Bien, bah avant de se lancer dans l'aventure de 3D Studio Max, nous allons regarder en fait comment il s'est installé dans Windows. Alors ça, c'est une partie assez intéressante. Je vais aller sur le disque dur et bien sûr, 3D Studio Max est dans la partie programme. Pour rappel, je suis ici sous Windows Vista. Dans la partie programme, vous allez retrouver une zone Autodesk, 3D Studio Max 2010. Vous allez retrouver comme ça vos matériaux et différentes, je veux dire, fichiers qui servent à lancer le programme. Alors ça c'est le programme qui serait pour tout le monde. Par contre, quelque chose de très intéressant, nous allons aller voir ici l'utilisateur. Lorsque je clique sur utilisateur, je retrouve deux utilisateurs, l'accès à tout le monde et moi-même. Dans documents, je vais retrouver un répertoire 3D Studio Max contenant archives, autobac pour les fichiers qui vont s'auto sauver les fichiers d'importation, les matériaux, les previews, etc., etc. Nous allons les voir par la suite en détail, de toute manière. Bien, ça, chaque utilisateur va avoir son propre répertoire 3D Studio Max dans un dossier, document. Je reviens à utilisateur. Il y a par contre des fichiers cachés très importants. En effet, lorsque vous installez un plugin ou que vous mettez à jour 3D Studio Max ou vous modifiez certains paramètres, il y a un fichier 3D Studio Max.ini qui est éditable avec un fichier texte tout simplement, qui est en fait une mise à jour. Alors ce fichier n'est pas visualisable pour le moment. Pour ce faire, je vais appuyer sur Alt qui est un raccourci clavier pour Windows, Outils et aller dans les options des dossiers. L'affichage, je vais demander d'afficher les fichiers et dossiers cachés. Ainsi d'ailleurs que ce qu'ils contiennent, ne pas masquer les extensions ni les fichiers protégés. À l'invite, je fais oui et je valide. Observons maintenant que j'avais deux utilisateurs, JA moi-même et public. Je retrouve d'autres gestions en fait. Alors je vais retourner sur JA, sur mon dossier, dans Application Data local et je vais retrouver Autodesk, 3D Studio Max et à force de descendre dans tous les dossiers, je vais revenir ici dans ce qui est la personnalisation de mon 3D Studio Max, celui qui correspond à l'utilisateur JYA, Jean-Yves Arbois. Je retrouve ici le fichier 3D Studio Max INI, double clic, moi j'ai déjà mis en fait qu'il pouvait souffrir avec simplement un bloc note et on retrouve tous mes paramètres et mes personnalisations. Ce fichier 3D Studio Max Ini, vous pouvez le supprimer sans aucun problème lorsque vous remarquez que 3D Studio Max devient un peu instable. Lorsque vous allez relancer 3D Studio Max en cliquant sur cette icône, il va se recréer à nouveau. Bien. Par contre, lorsque vous désinstallez 3D Studio Max, il garde toujours en mémoire euh, les codes ou vos numéros de licence. Vous pouvez supprimer ce genre de choses ici, Autodesk. 3D Studio Max. Et là, vous avez différents types de fichiers relatifs à l'installation dans le répertoire 3D Studio Max. Ça, c'est pour l'utilisateur JYA, c'est-à-dire Jean-Yves Arbois moi-même. Par contre, si vous cliquez sur All User, vous allez retrouver aussi un répertoire Autodesk qui contient des informations liées à votre installation, avec vos numéros de licence et autres. Bien, je vais supprimer. Euh, l'option des outils ici, option des dossiers concernant l'affichage des fichiers cachés et dossiers pour ne pas les laisser encore visibles. Donc ne pas afficher les dossiers cachés et masquer les extensions et les fichiers protégés par Windows pour revenir comme avant. Bien, je vais maintenant lancer 3D Studio Max pour vous montrer un petit peu ici comment cela fonctionne. Donc c'est bien mon 3D Studio Max sur l'utilisateur YA. Chaque utilisateur qui va lancer 3D Studio Max va avoir, pour rappel, accès à ses propres dossiers qui se trouvent dans Documents. Le lancer de 3D Studio Max dépend bien sûr de la puissance de votre machine, carte graphique, mémoire vive et autres. Remarquons ici Sauver. Je retrouve les scènes. Donc par défaut, je me retrouve dans le fichier scène. C'est user Jean-Yves Arbois, Documents, 3D Studio Max, scène. Et on retrouve comme ça exactement ce que je vous disais tous les répertoires, les dossiers qui sont dans votre document à vous. Voilà pour commencer et nous allons commencer maintenant après par la suite euh, notre euh, aventure dans la modélisation. Bien, nous voilà donc dans 3D Studio Max. Alors 3D Studio Max, vous allez voir un multi de quatre vues. Attention, ces vues, vous les validez avec le bouton de droite de la souris. En effet, le bouton de gauche permet de sélectionner ou de désélectionner un objet. Vous risquez donc, si vous validez la vue avec le bouton de gauche, tout simplement de désélectionner ou de sélectionner un autre objet. Retenez donc, pour valider les vues, ces curseurs de droite. Vous pouvez changer les proportions des vues en maintenant votre pointeur de souris au centre ou sur les côtés. À ce moment-là, vous changez horizontalement ou verticalement les proportions et au centre, vous changez les proportions des fenêtres. Pour annuler, curseur de droite lorsque vous avez ces flèches de déplacement, reset layout. Vous avez différentes vues frontale, top, la vue de dessus, left, gauche et perspective. Vous pouvez changer le type de vue tout simplement en connaissant par cœur vos raccourcis clavier. En effet, dans la vue perspective, si je tape F, j'ai la vue frontale, T, top. Left, etc. Si vous êtes un peu perdu, vous appuyez sur V et vous allez retrouver comme ça les différentes vues que vous pouvez avoir rapidement. Back, arrière, dessus, dessous, gauche, droite, perspective. La vue caméra, dans ce cas-ci, il n'y en a aucune. Ou la vue isométrique, appelée la vue user. La vue user est une vue particulière à éviter pour le moment. Voici la vue perspective. Pour rappel, pour naviguer dans vos vues, bouton de droite. Par contre, pour modifier l'affichage ou tourner dans la vue, Alt, bouton du milieu. Pour revenir un petit peu au bouton du milieu de la souris, avant de faire le bouton du milieu de la souris dans votre multi-fenêtrage, vérifiez bien en appuyant sur le bouton de la souris que vous obtenez bien une main. En effet, si vous n'avez pas cette icône qui symbolise le fait de pouvoir déplacer à gauche ou à droite votre fenêtrage, cela signifie que dans Windows, le bouton du milieu de la souris n'est pas bien reconnu. Je répète, pour tourner, c'est Alt. Ici, je suis dans une vue perspective. La vue perspective, comment fonctionne-t-elle La vue perspective, c'est très simple. Vous obtenez une direction. Ici, c'est moi qui dessine au-dessus de l'écran, okay, à l'aide d'un utilitaire. Cette direction a des raccourcissements. Ces raccourcissements sont tout simplement les points de fuite. On va très bien les voir lorsque je vais changer. Voilà, Alt, bouton du milieu. Je vois très bien ici que j'ai un raccourcissement et donc une réduction des tailles sur la distance. Et une réduction de la taille sur la profondeur. Ceci, c'est grâce à la vue perspective. Pour rappel, P au clavier. A l'inverse, si je fais U au clavier, cette vue est orthographique, ce qu'on appelle généralement la vue user. Lorsque je réduis et que je me rapproche, je peux remarquer que cette vue se dessine jusqu'à l'infini. La vue user est une vue qui n'y a pas de déformation. Pour remarquer que ce sont toujours des parallèles. C'est une vue orthographique appelée user. À éviter. En effet, elle est généralement utilisée pour le dessin scientifique, euh, l'architecture ou autre, mais pas dans notre cas. Rebasculons sur la vue perspective avec P au clavier. Les vues user, donc orthographiques que vous venez de voir auparavant, ne sont pas bonnes à utiliser pour le rendu. Elles ne prennent pas en compte les effets volumétriques comme les lumières ou autres. Les seules vues ayant... Euh, un axe Z, une profondeur des perspectives et ce genre de choses sont les vues perspectives, son nom l'indique bien, et les vues caméra que nous verrons par la suite. Vous pouvez personnaliser vos vues tout simplement en allant dans View, Viewport, Configuration, Layout. Vous retrouvez ici différents modes prédéfinis d'affichage. Et là, toujours le même combat, il n'y a pas de souci. Voilà pour personnaliser un petit peu vos fenêtres. Pour revenir, View, Viewport, Configuration, et vous reprenez l'affichage qui vous intéresse. Je remets celui-ci qui est celui par défaut. Top, Left, Front, P Perspective. Alt, bouton du milieu pour être en mode Rotation. Voilà pour ce qui est en fait des configurations des vues pour le moment. Nous allons voir par la suite les manipulations qui vont nous permettre de manipuler donc forcément les vues et les objets dans ces vues. Bien. Donc soit vous connaissez vos raccourcis clavier par cœur, soit vous avez ici cette petite chose. Attention à ne pas confondre. Ce petit cube viewport vous permet de voir d'une manière frontale, d'une manière right, de manière top, orienté différemment ou revenir à l'origine. Bien. Mais attention, ce n'est pas les vues top ni les vues left, c'est de voir en dessus au dessus la vue perspective de voir en vue left la vue perspective. À déconseiller. Personnellement, vous allez voir que nous allons travailler avec une caméra ou autre, laissons ça pour une orientation plus architecturale. Concernant les vues maintenant. Concernant les vues, nous avons vu que nous pouvons Viewport Configuration, changer avec le layout. Vous avez d'autres choses aussi très intéressantes. Lorsque cette vue perspective vous intéresse, vous pouvez sauver votre vue. Save Active View Perspective. Et maintenant, avec le bouton du milieu, je fais peut-être un peu n'importe quoi. Voilà. View. Restore Active View Perspective. Pour la retrouver. Vous pouvez comme ça sauvegarder une vue qui peut vous intéresser. Bien. Revenons un petit peu à la manipulation. Alt, bouton du milieu, permettait de tourner. Sachez que si vous appuyez sur Alt et en même temps sur Shift, c'est-à-dire majuscule, vous pouvez bloquer la rotation. Comment bloquer cette rotation Il est très important dans 3D Studio Max de ne pas déplacer la souris n'importe comment. Déplacez-la toujours à l'horizontale ou à la verticale. Je vais appuyer sur Alt et majuscule en même temps. Et je vais déplacer ma souris à la horizontale pour obtenir une rotation horizontale. Lorsque je déplace ma souris à la verticale, j'obtiens un blocage de la rotation à la verticale. Shift bloque le raccourci Alt bouton du milieu. Et c'est exactement pareil pour le déplacement. Le déplacement est libre. Si j'appuie sur Shift, je bloque à l'horizontale mon déplacement ou à la verticale, ce qui est des fois très intéressant dans une vue caméra pour faire une sorte de panoramique. Si je peux me permettre, je vais ici vous déconseiller d'utiliser la roulette pour vous rapprocher ou vous éloigner. Je vous conseille toujours de faire CTRL-ALT pour vous rapprocher progressivement et vous éloigner progressivement. Sachez que Alt-GR est la combinaison de CTRL-ALT. Avec le bouton du milieu, vous comme ça vous zoomez et vous dézoomez progressivement. Vous retrouvez ici différents raccourcis clavier. Alors, les raccourcis qui sont ici vous permettent de résumer sur la vue, active, la grille ou les objets. Vérifions, je clique et je recadre. Le raccourci est très simple, c'est Z pour recadrer automatiquement. Vous recadrez sur quoi Ici, vous recadrez sur la grille. Nous allons créer notre premier objet pour comprendre aussi un peu mieux les manipulations. Pour créer un objet, tout simplement, créer 3D géométrie et nous allons utiliser cette fameuse théière. Sachez que cette théière, de manière anecdotique, c'est en fait notre objet, premier objet créé en 3D. D'où cette petite tipote qui est un clin d'œil historique. Pourquoi j'ai créé cet objet Créer tipote. Un simple clic et une manipulation. De la souris va vous permettre de créer cette tipote. Cliquez, maintenez la pression et déplacez. Pour supprimer, supprimez au clavier. Si je fais Recadrer, vous pourrez remarquer qu'il ne recadre plus par rapport à la grille, mais par rapport à l'objet. Lorsque je fais Alt, Rotation, ça tourne par rapport à l'objet, ou par rapport à la grille, on ne sait pas trop. En effet, je vais supprimer cet objet. Et je vais créer maintenant ma tipote ici. Regardez bien lorsque je fais Alt, bouton du milieu, vous remarquez que je tourne par rapport au centre. Pour éviter cette problématique et tourner par rapport à l'objet, je vous conseille de modifier certains paramètres qui sont ici en dessous. Ces paramètres sont tout simplement les raccourcis iconographiques de pouvoir zoomer ou dézoomer sur toutes les vues, de recadrer sur l'objet, de recadrer toutes les vues sur l'objet. Mais nous allons voir en fait les raccourcis clavier beaucoup plus simples. Z permettant de recadrer sur tout. Le seul problématique que nous avons ici, c'est celle que je viens de voir auparavant, c'est-à-dire Alt, bouton du milieu et nous remarquons que la rotation se fait par rapport à l'objet ou par rapport à la grille. Pour éviter ces soucis, vous devez choisir cette option L'icône ici appelée Orbit est assez intéressant. Il vous permet d'avoir des poignées de contrôle qui sont l'équivalent du Shift pour contrainte à l'horizontale ou à la verticale. Par contre, il est très intéressant lorsque vous regardez ceci. Regardez bien, je clique sur l'icône et je prends le tout dernier. J'ai plusieurs options. Le tout dernier permet de faire une rotation par rapport à ce qui est sélectionné. Il y a trois icônes. Le tout premier en haut. C'est pour sélectionner la rotation par rapport au centre de l'univers, la grille par défaut, par rapport à l'objet ou ses composants. Sachez qu'un objet 3D est composé de points ou de faces. Je prends généralement le tout dernier, ce qui me permet comme ça, bah, qui peut le plus peut le moins. Pour enlever ceci, clic droit dans la vue. Je répète, je prends le tout dernier icône. Pour enlever cette manipulation, clic droit dans la vue. Et maintenant, je tourne automatiquement par rapport à mon objet sélectionné. La rotation est par rapport à ma sélection. Bien. File, reset, pour nettoyer tout mon environnement. Je répète. Alt, bouton du milieu, une rotation. Alt, Shift, vous bloquez. CTRL, ALT, vous dézoomez, vous rapprochez. On va créer un simple objet, le mettre ici à l'extérieur de la grille. Pour pouvoir tourner autour de cet objet avec ALT, bouton du milieu, n'oubliez pas d'activer le tout dernier icône. Lorsque vous avez ce menu, s'il vous encombre la vue, clique droit. Voilà pour commencer à manipuler un petit peu nos vues. En fait, ici, ce n'est pas l'objet qui bouge, mais c'est vous qui tournez autour de cet objet. Nous allons maintenant, par la suite, faire bouger les objets, voir les autres options d'affichage. Donc voilà un peu pour tourner ou vous rapprocher, vous éloigner ou déplacer un peu votre vue. Si la grille vous embête, j'ai au clavier, tout simplement, pour cacher ou afficher la grille. Donc j'ai comme le mot gris, tout simplement. Bien. Maintenant, les objets. Vous pouvez remarquer qu'à l'affichage, vos objets ont une boîte englobante, une quadrature comme ça de la géométrie. C'est ce qu'on peut appeler l'espace objet. C'est très important, on viendra par la suite de la définition des objets. Là, je vous enverrai au chapitre sur la définition des objets et qu'est-ce qu'un objet 3D. C'est très 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 important de bien comprendre ça, justement, pour tout ce qui va suivre en termes de modélisation et surtout d'animation ou de manipulation de la géométrie. Bien, pour mes vues. Ben voilà. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul objet. Et cet objet, bah, je pourrais par exemple le déplacer, le dupliquer ou autre. Pour déplacer mon objet, bon, vous avez différentes techniques. Vous avez ici au-dessus déplacer, rotation, changement d'échelle. Ici, ce n'est plus la vue que je manipule, mais l'objet. Lorsque je viens sur déplacer, vous avez différents axes. Les axes ont tous les mêmes couleurs dans les environnements 3D. Red, Green, Blue, Rouge, Vert, Bleu, respectivement X, Y, Z. Il est à noter que le XY est toujours à la base de l'objet. Et chaque fois que vous allez créer, le Z est vers le haut de l'objet. C'est une des particularités de 3D Studio Max. En effet, si on regarde la vue, on peut considérer que ma vue est de cette manière. Vous regardez la vue. Ceci serait donc par définition l'X, l'Y et le Z serait dans la profondeur. Alors que si j'observe, l'objet a été créé à sa base sur un XY qu'on appelle local et le Z est vers le haut. À ne pas confondre donc les axes locaux, c'est-à-dire propres à la géométrie et à la création de votre géométrie. La géométrie était créée sur le plan du bas. Ce sont donc ces axes. Y et X, et son élévation est Z. Ça, c'est par rapport à la géométrie. Je retrouve donc les axes relatifs à l'ordre de création. Si vous rapprochez et vous éloignez, vous pourrez remarquer que les axes d'affichage adaptent automatiquement leur taille. Vous pouvez modifier cette taille en appuyant sur le plus du clavier. Et vous pouvez les réduire aussi en appuyant théoriquement sur le moins. Lorsque vous avez une erreur de taille, c'est le cas de le dire, par rapport à ce type de manipulation, vous pouvez aller dans Customize, Préférences, Préférences Settings, vous retrouvez Gizmo, et là vous allez retrouver la taille. Dans le cas où par exemple votre Gizmo devient trop grand, la taille maximum est de 100, voilà vous pouvez revenir Customize, Préférences, Gizmo et changer la taille. Je préfère appeler ça un manipulateur de déplacement qu'un Gizmo. Donc, pour rappel, avec la touche ⁇ Plus, vous pouvez l'agrandir. Okay. Ici, j'aurai un peu de mal parce que c'est un ordinateur portable. Donc, Préférences, et je vais le remettre à la taille. Très bien. Donc, les manipulateurs sont ici affichés. Et vous remarquez qu'à chaque fois que je place ma souris, un jaune okay, vient valider l'axe de déplacement. X, Z, Y. Si je me ramène plus vers l'intérieur, j'ai donc deux axes qui sont sélectionnés. Ce qui est très aisé pour déplacer à l'horizontale mon objet. Ou sur un plan 2D. Très bien. Déplacer. Vous retrouvez le mode déplacement, curseur de droite sur l'objet, Move. Rotation, curseur de droite, rotation. C'est exactement la même chose que les icônes qui sont ici au-dessus. Ici, c'est donc l'objet qui va bouger. Et vous remarquez que ce n'est pas la vue. N'oubliez pas le CTRL-Z, bien sûr, pour annuler la manipulation. Vous retrouvez les axes qui se mettent en surlignée jaune. Les axes sont toujours pareils. Bleu, rouge, vert, rouge, vert, bleu, red, green, blue, respectivement X, Y, Z. Je fais les CTRL Z pour annuler mes ma manipulations. Le changement d'échelle, lui, est ici, ou bien toujours pareil, curseur de droite, scale. Vous retrouvez pareil un changement d'échelle sur deux axes, un seul axe ou proportionnel. C'est très important et nous reviendrons par la suite sur l'importance de ne jamais changer l'échelle et des problématiques que cela peut venir, okay, surtout en animation. Je viens donc. La manipulation de la vue, Alt, bouton du milieu de la souris pour la rotation. Je sélectionne mon objet, déplacement, rotation, échelle. Les raccourcis clavier utilisés sont W, E pour la rotation et R pour l'échelle. Et de là vient l'erreur. R, c'est bien pour le changement d'échelle. Et si je reviens à mes vues, vous remarquez qu'ils ont laissé R. C'est une des erreurs. Enfin, bon, c'est pas compliqué. Donc, W, E, R. W, E, R. Et la sélection, c'est Q. En effet, lorsque vous voulez sélectionner simplement un objet, vous appuyez sur la lettre Q et vous n'avez plus de flèche de déplacement, de rotation ou d'échelle. Ceci dit, c'est parce que nous sommes sur un clavier AZERTY, mais Q, W, E, R sont les quatre premières lettres d'un clavier QWERTY, tout simplement. La manipulation des vues des objets bah, n'a plus de secret, on va dire. Alors, justement, euh, vous avez remarqué que j'ai agrandi. Est-ce qu'il est vraiment utile d'agrandir toute cette vue Étant donné que vous connaissez maintenant les raccourcis clavier de vos vues, on pourrait tout à fait l'agrandir autrement, c'est-à-dire qu'elles prennent tout l'écran et qu'on n'ait pas cette division. Pour agrandir cette vue, c'est Alt W en raccourci clavier. Alt W est une fonction interrupteur. Vous la mettez, ça agrandit, vous le remettez, ça revient comme auparavant. C'est exactement la même chose que l'on retrouve ici en bas. Vous voyez, généralement, on utilise plus les raccourcis clavier. Alors, mes objets, ben, mes objets, je peux en avoir comme ça, plusieurs et afficher différemment. On peut manipuler différemment l'affichage des objets. En effet, les objets affichés de cette manière. Avoir un certain poids pour votre carte graphique. F3 est une fonction interrupteur qui permet de basculer l'objet en mode filaire où vous voyez comme ça ses composants ligne, segment, face, vertex, donc les sommets, etc. F3 permet de voir en filaire ou en mode ce qu'on appelle lissage okay, et, euh, et lumière. Alors, lissage et lumière, ben voilà, Smooth and Highlight, c'est le mode affiché. Si j'appuie sur F3, je retrouve le mode Wireframe, filaire. Donc vous avez ici un témoin qui vous montre comment est votre affichage. Si j'appuie sur F4, j'ai en plus les faces qui se dessinent par-dessus. Edge, faces, les faces et les segments. On peut comme ça cumuler avec le raccourci clavier F3 et F4 différents modes d'affichage. Évidemment, si vous avez un menu ici, ça signifie que vous pouvez aussi cliquer dessus et choisir ce que vous désirez. Ouais, donc, ça, c'est vraiment un choix okay, des modes d'affichage un peu différents. On ne va pas s'amuser à les passer tous en détail parce que je vous jure qu'il y en a quand même pas mal. Ce qu'on va voir surtout ici dans 3D Studio Max, c'est la manière de, de travailler pour produire. On va tous les voir, mais en fonction d'exercices pragmatiques. Je suis dans la vue perspective. Et si j'ai oublié mes raccourcis clavier, regardez, voici les raccourcis clavier. Et on peut retrouver front, perspective. Ou réappuyer tout simplement sur F ou P pour la perspective. Vous remarquez qu'au fur et à mesure, les perspectives ne se sauvent pas. Vous pouvez les sauver avec ce que nous avons vu auparavant. View. Save Active Perspective, rebasculer par exemple sur Frontal, Perspective, View, Restore Active Perspective. Bon, ça c'est pour retrouver la vue Perspective. Voilà comment vous pouvez éventuellement optimiser votre affichage, F3, ou rajouter un affichage plus complexe qui va vous permettre de voir les composants pour la voilà, manipulation par la suite du modeling qui est plus aisé de cette manière. Je reviens un peu à manipulation W pour déplacer. Vous vous souvenez qu'on a comme ça les trois axes de déplacement. Toutes les manipulations que vous faites en termes de transformation, en effet, transformation, curseur de droite sur l'objet, move, rotation, échelle ou select. Pour rappel, Q, W, E, R. Les transformations sont annulables tout simplement avec CTRL Z. Ils sont restaurables avec CTRL Y. Dans Max 2010, vous retrouvez ici les flèches avec l'historique de restauration. Move, Select, Annulation et la liste en cliquant sur la petite flèche. On a comme ça différents niveaux. OK de restauration et d'annulation. On les retrouve à cet endroit. Très bien. Alors, on a créé un objet, on le déplace, et nous avons ici différentes valeurs. Ces valeurs de déplacement, à quoi correspondent-elles En effet, c'est un peu comme si j'avais créé mon objet. À quoi il correspond À quelle taille a-t-il La scène, mon environnement, toutes ces choses, ces vues. Ben, en fait, c'est un gros problème, parce que si vous créez maintenant, imaginons une lumière... Votre lumière est-elle dans une boîte d'allumettes ou dans un hangar d'avion Vous imaginez bien sûr la problématique que ça peut avoir. En effet, une lampe de 60 watts dans une boîte d'allumettes surexpose tout, alors que 60 watts dans un hangar d'avion, ben, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est le même problème quelle est la taille de ma tipote Pour obtenir les informations sur les objets, ce n'est pas d'en créer, mais à côté d'en modifier, qui permet de modifier sa taille ou autre. Mais vous avez aussi les segments dans lequel la tipote ou d'autres informations. Mais la taille. Quelle est la taille de l'objet Quelle est la taille de la scène Voilà un gros problème. Manipuler les objets, manipuler une scène, oui. Mais quelle est la taille Pour ce faire, vous devez absolument, avant de faire quoi que ce soit, aller dans Customize, Unit Setup, et déterminer la taille en centimètres. Moi, ici, je mets en métrique centimètres. Je vois que ma tipote fait 14 centimètres voire plus pour annuler tout ça je reviens là et je fais un reset vous avez un message lorsque vous avez une scène qui n'a pas été encore sauvegardée voulez-vous sauver votre scène non tu réellement sûr oui voilà je retrouve ma configuration initiale je vais créer maintenant une boîte créer 3D une boîte la première face xy de la boîte et z de la boîte pour rappel, donc, lorsque vous créez pour la première fois, le premier clic de la souris va créer tout simplement la base de votre objet, c'est-à-dire XY de l'objet, et partant du centre, le Z de l'objet local qui va faire son élévation, autrement dit son épaisseur que l'on retrouve ici. Vous remarquez maintenant que tout ça est exprimé en centimètres. Bien. Imaginons que je veux créer une boîte de 50 par 50. Ça va être très intéressant ici. Ça va me permettre non seulement de savoir la taille de mon objet, mais la taille de ma scène. 50 cm, je valide avec Enter. Pour basculer sur la valeur en dessous, j'appuie sur Tab. Alors la touche Tab, c'est à côté du A à l'horizontale. Ce sont les deux flèches qui sont à l'horizontale. 50, Tab, 50. J'ai un cube qui fait 50 par 50. Regardez bien ce que je vais faire. D'où l'importance des premières leçons de Max et l'environnement de Windows. Save as, directement, je me retrouve dans C, User, J, A, Document, 3D c, Max, Send. Je vais donner un nom, un nom bien particulier. Alors, ce nom, Max, en un seul mot, Start, enregistre. Alors ça, c'est très intéressant, vous allez voir, parce que je sais que cette boîte fait 50 cm sur 50 cm. Je peux la manipuler, curseur de droite move, la mettre ici ou la supprimer. Je reviens ici et je fais reset. Voulez-vous sauvegarder vos changements Non, parce qu'il n'y a rien. Oui. Et vous retrouvez votre scène de départ. Je vais fermer 3D Studio Max et je vais le relancer. Le lancement de Max dépend bien sûr de la configuration de votre machine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai sauvé. Un fichier dans le répertoire scène qui appartient à l'utilisateur j -Y A, c'est-à-dire Jean-Yves Arbois dans mon cas. Le fait d'avoir mis la scène et dans le répertoire scène, cette scène c'est appelée MaxStar, M A X T S T A R. Eh bien, je vais la retrouver automatiquement. C'est la scène de référence pour le début, et je vais retrouver aussi Unit Setup, les centimètres et tous mes autres raccourcis clavier. Si vous allez dans CFS ici, que vous le supprimez avec curseur de droite, supprime, que vous faites une réinitialisation, reset, ou que vous relancez max, vous retrouvez une scène par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de max, max start. Donc max start, oups, voilà, je l'ai bien dit, euh, ben, va vous permettre d'avoir comme ça un étalon dans votre scène. Et automatiquement... Unit setup restera toujours en centimètres. Vous n'êtes pas obligé de faire Max Star pour avoir les centimètres, mais par contre pour avoir une scène de référence au début, oui, souvent très intéressante pour faire un personnage. En effet, imaginons une boîte que je crée rapidement. La hauteur de mon personnage sera donc de 1m80, donc 180 cm. Ok. On va considérer qu'il a 30 cm d'épaisseur, et un peu plus large d'une quarantaine de cm. Voici. Ben, si ceci est mon gabarit, save as max start, j'enregistre. Je peux créer n'importe quel objet. Reset, je ne sauvegarde pas. Et je retrouve automatiquement mon objet ici, max start. Alors nous avons vu comment on peut personnaliser 3D Studio Max avec euh, un gabarit. Maintenant, on va s'amuser un petit peu à autre chose. Vous avez un écran de démarrage. L'écran de démarrage n'est pas celui qui, au début, j'ai supprimé, qu'on appelle Essential Skill Moving. Donc ça, c'est euh, simplement pour avoir les petites Z et accéder au web. C'est le fameux écran de démarrage où on voit le logo de 3D Studio Max. Celui-ci. Donc je relance pour vous. Voilà. Si jamais vous voulez le personnaliser, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de créer un fichier BMP qui s'appelle Splash s p L A S H en extension BMP. Et de le placer directement dans le répertoire d'installation de votre programme 3D Studio Max. C'est ce que nous allons faire. En effet, je vous rappelle donc que 3D Studio Max, son installation est sur le disque dur C, dans la partie programme. Donc c'est là où je vais y aller d'ailleurs. Voilà, Autodesk 3D Studio Max. Si j'observe tous les fichiers, voilà, je vais en avoir un qui s'appelle Splash. Je clique celui qui porte le même nom et je déplace tout simplement. Je remplace et vous relancez 3D Studio Max. Vous personnalisez comme ça et vous épatez un peu vos copains. Voilà un petit peu pour personnaliser le lancer de 3D Studio Max, ça ne ralentit en rien le logiciel, mais ça vous permet comme ça d'avoir un petit truc un peu plus agréable au lancer. De quoi est capable votre 3D Studio Max ou je dirais plutôt votre carte graphique. Pour cela, vous devez aller dans Help, diagnostic de vidéo hardware, le hardware de votre vidéo. Vous allez avoir ici différentes informations. Le type de carte graphique que vous avez, le modèle, mais enfin, ça, c'est pas trop intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la qualité dont vous pouvez afficher. On verra par la suite que 3D Studio Max 2010 a énormément évolué à ce niveau-là. Voir en temps réel, les effets Sun et Sky, dans mon cas, c'est supporté. Ça, on verra dans la partie lumière où je vous reporte sur les DVD de Mental Ray ou autre. Temps réel, les matériaux spécifiques à l'architecture, supportés. Donc, si vous ne voyez pas que certaines choses sont supportées, ben, ne criez pas au bug, mais mettez une carte graphique un peu plus à la hauteur. Sachez que n'importe quelle carte graphique, euh, je veux dire, d'une génération d'une euh, NVIDIA 8000 ou 9000, va suffire amplement. 512 MO, c'est quand même pas mal. Hein. Bien, alors ben, maintenant que je sais que j'ai à peu près ça, j'aimerais bien savoir jusqu'où on peut aller dans le nombre d'affichage. Lorsque je vous crée une théière, par exemple, cette théière est constituée de segments de points. On verra ça dans la partie théorie de la 3D. Si j'appuie sur F4, je vois la subdivision. Le nombre de segments est de 4. Si j'augmente le nombre de subdivisions, ben j'augmente forcément le poids d'affichage parce que j'ai énormément de faces. Pour avoir les informations, vous appuyez sur 7 au clavier. Pour avoir les informations, qu'il contient, c'est-à-dire le nombre de polygones, le nombre de vertex. FPS signifie le nombre de frames par seconde. Si je bouge ma vue Alt, bouton du milieu, je vois que je peux faire 460 frames secondes, en sachant qu'une vidéo est 25 images secondes, j'ai de la marche. Par contre, lorsque je mets la segmentation au maximum, le segment 64, je remarque que le nombre de polygones de ma tipote, je vais appuyer sur F4 pour ne plus voir le filaire, et de 262 000 polygones je vais faire bouton de droite sur cet objet et activer le déplacement de transformation move choisir la flèche appuyer sur shift au clavier et déplacer automatiquement je vois que je suis à au double forcément donc un demi-million de polygones je fais une simple copie je sélectionne les deux typotes raccourci clavier ctrl A pour sélectionner les deux objets et je duplique. Si je duplique comme ça, j'obtiens maintenant un million de polygones. Toujours en copie. On verra par la suite ce que la signification d'instance et référence. Très bien. Je sélectionne tout, CTRL A. Et je duplique à nouveau, cette fois-ci, quatre fois. Attention, ayez pitié de votre ordinateur. Voir s'il va suivre. Maintenant, si je tourne autour... Je vois que j'ai beaucoup de mal pour pouvoir tourner autour de ma scène. Certains objets disparaissent et se mettent en mode boîte. Cette option, c'est l'option de dégradation de l'affichage. Dans View, cette option est activée par défaut. Adaptative dégradation. O au clavier. Si vous appuyez sur O au clavier, View, l'adaptatif est désactivé. À ce moment-là, il va donner priorité à l'affichage, mais évidemment, vous risquez d'être saccadé. Si vous faites haut, il va donner priorité au mouvement et vous avez une optimisation. Les objets peuvent devenir en mode boîte. Bien, Tout ça va dépendre de votre carte graphique. Ici, je suis à 5 millions de polygones. La gestion de la dégradation, sur le petit plus, vous avez ici Configure et vous avez Adaptative dégradation. On peut choisir le nombre de frames et la manière dont l'affichage va se faire, en boîte, en point ou carrément cacher les objets. On peut changer aussi la dégradation par rapport au rapprochement ou l'éloignement de la caméra. Je vais le laisser en boîte. On peut s'amuser à le mettre en point en plus des boîtes. Ça, c'est au cas où vous avez des objets un peu plus complexes pour voir la manière dont ils sont modélisés. Pour ce faire, je vais tout sélectionner et doubler. Pour vraiment aller aux limites de ma carte graphique, je vais faire une copie. Okay. Je suis à 10 millions de polygones. Là, je vois déjà que ça commence à ralentir. C'est le moins qu'on puisse dire. Et dès que je bouge, quand il veut bien bouger, voilà les boîtes. Et on voit qu'il s'affiche en mode point ce qui est plus léger que les boîtes. Je vais supprimer une grande partie des typodes parce que ça ne sert à rien non plus d'aller au maximum, c'est-à-dire aller jusqu'au plantage. Je vais revenir dans Configure, Adaptative et le laisser en boîte. Vous avez d'autres systèmes aussi d'optimisation d'affichage. Pour ne plus voir ce genre de choses, donc 7 au clavier. L'optimisation de l'affichage, qui souvent est confondue pour des bugs, vous avez des fois votre scène qui est, quand vous vous rapprochez très proche d'un objet, on a l'impression qu'elle est saucissonnée, c'est-à-dire coupée. Ce principe, c'est ce qu'on appelle en fait sur le mot perspective, cliquez sur le mot perspective, le clipping. Le clipping, c'est pour couper une zone qui ne sera pas prise en compte dans l'affichage. On voit ici que si je me rapproche, je coupe la zone. Les objets qui sont derrière cette zone ne sont pas pris en compte dans l'affichage. Je peux faire ceci aussi en me rapprochant. Et je coupe comme ça la zone qui m'intéresse. Souvent considéré comme un bug graphique, il suffit tout simplement de demander de l'afficher et de les pousser au maximum pour éviter que la scène soit coupée. En effet, je vais revenir sur le mot perspective, viewport clipping. Si vous désactivez, sachez qu'automatiquement, il est actif, mais il n'est pas affiché. Si vous voulez le mettre vers l'infini au maximum et vers l'infini au minimum, vous cliquez sur le mot perspective viewport clipping ou caméra, bien sûr, et au lieu qu'il soit dans sa valeur par défaut ici, vous le poussez au maximum et vous le poussez au maximum du plus bas pour que le clipping n'ait pas lieu dans votre scène. Souvent, les gens pensent que ceci est un bug d'affichage. C'est simplement le clipping. C'est une manière d'optimiser, mais quand il est mal interprété, on a du mal de comprendre. Une autre optimisation qu'on pourrait considérer intéressante, c'est la propriété des objets. En effet, cet objet est vu en termes de filaire, lissé ou non. Évidemment, vu le maillage conséquent que j'ai mis, Qu'est-ce que j'obtiens comme filaire ben, Disons qu'il est quand même pas mal. Et forcément, si je recule, hein, j'ai un aplat de couleurs. Bien. Je pourrais demander que cet objet, curseur de droite, object propriété, que cet objet soit vu display propriété. Regardez bien, en mode boîte. À ce moment-là, uniquement lui est vu en mode boîte. Vous pouvez faire ça avec une sélection multiple. Curseur de droite, Object Propriété, tous les voir en mode boîte. Display Propriété est donc une manière de voir aussi notre géométrie. Petite astuce, autre, File Reset. L'autre astuce est souvent oubliée. Je sais que c'est le début, mais je préfère quand même vous montrer les trois petites choses. Tant qu'à faire, autant s'amuser un petit peu. Je vais créer une tipote. Et je vais la déplacer. Bien. Je vais tout simplement dupliquer différents objets. Vous avez ici une ligne du temps. Je sais que c'est un peu prématuré de voir l'animation maintenant, mais ce n'est pas forcément l'animation. Pour jouer, c'est Play. Comme tout le monde a un magnétoscope, on peut quand même sans souci euh, voir les fonctions Play, la ligne du temps. Revenir au début, aller à la fin et faire Play. Ah, me direz-vous, pourquoi il nous montre ça maintenant ben Parce que c'est une autre optimisation aussi. Si jamais vous avez déjà fait ou une petite scène ou déjà joué à, un peu à max, vous avez déjà remarqué que en fait, ben, si votre personnage est animé, vous n'avez pas besoin par exemple de voir le décor. Très bien. Et ben, on peut tout à fait sélectionner un objet. Et regardez, je maintiens la pression sur la fonction play et deux flèches apparaissent. Une plus foncée, une plus claire. Je prends la plus claire et voilà. Lorsque je sélectionne un objet, je fais play avec cette flèche plus claire, il n'y a que l'objet sélectionné qui va s'afficher. Surtout s'il était animé. Ici, bien sûr, mon objet n'est pas animé. Si je fais ça, je vois les deux. Et si je fais celui-ci, je ne dois avoir qu'un. Évidemment, comme mon objet n'est pas animé, ça ne va pas être terriblement euh, convaincant pour le moment. Alors, pour animer mon objet, je clique sur AutoKey, je bouge en mettant sur la ligne du temps. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en train de faire votre première animation. Et regardez, Play. Voilà. Play. J'enlève AutoKey. Aucun objet est sélectionné, un objet est sélectionné. C'est une des manières aussi d'optimiser. Je répète, on a différentes manières d'optimiser les objets. Soit dans View, Viewport Configuration, bah oui, c'est exactement la même chose que Perspective et sa configuration. Adaptative dégradation en boîte, etc. En fonction de la vitesse en fonction de la profondeur de la caméra et de la distance. OK. Cette dégradation sera active si vous activez le raccourci clavier O. Il y a différents chemins, view, viewport configuration, adaptative ou sur le nom de la vue perspective. Excusez-moi, ici sur le petit plus à côté de perspective, configure et vous retrouvez adaptative dégradation. L'autre système, c'est sur les propriétés de l'objet. Curseur de droite, Object Properties, Display Properties, voire en tant que boîte. OK. Vous pouvez aussi, lors d'une animation, demander que l'objet sélectionné soit oui ou non visible. Attention, il est préférable d'animer. Vous avez vu auparavant les problèmes que j'ai eus. Pour animer, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez vos objets, vous cliquez sur AutoKey, avancez sur la ligne du temps. Si vous avez fait tant soit peu un logiciel d'animation, c'est toujours pareil. Bien, mes deux objets sont animés. Enlevez AutoKey et quand vous cliquez sur la fonction Play, vous en avez plusieurs. Une plus foncée qui vous affichera d'office toute la scène, ou une seconde flèche en maintenant la pression de la souris qui vous jouera simplement l'objet sélectionné. Voilà, il y a comme ça différentes manières d'optimiser. N'oubliez pas non plus, on verra par la suite, de checker via le help le diagnostic de votre carte graphique. Une optimisation, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme optimisation Parce que nous avons vu une optimisation de l'objet dont ses propriétés et l'optimisation ou l'accélération de la vue. Maintenant, bon, on a différentes manières. Lorsque vous travaillez, vous risquez tout simplement de planter votre ordinateur. Il faut savoir que 3D Studio Max sauvegarde toutes les 5 minutes. En effet, ce que vous faites est sauvegarder toutes les 5 minutes. Cette sauvegarde, c'est dans Customize, Préférences. File. Vous remarquez que vous avez un auto-backup toutes les 5 minutes au nombre de 3 fichiers. Le nom s'appellera auto-backup, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, il va sauvegarder. Très bien. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que lorsque vous avez un plantage, eh bien, votre scène est entièrement sauvegardée. Alors, imaginons maintenant que j'ai un plantage. Voilà ce que je viens de faire. Je ferme 3D Studio Max. Je relance mon logiciel. J'attends que tout le logiciel s'installe. Bien. Encore une fois, ça rappelle l'importance de, des documents qui sont dans l'utilisateur. En effet, dans les documents, vous avez un répertoire 3D Studio Max. Open. Send. Pas du tout. Je reviens dans Max et je retrouve Archive. Autobac. Download A, hey, Autobac. Si je clique sur Autobac, je vois Autobac 1, 3, 2 et les exercices d'avant. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez demander d'avoir les détails, ce qui vous permet comme ça d'avoir l'heure, la minute et la taille de la scène. Il suffit tout simplement de les ouvrir. Voilà, et je retrouve la scène que je vous ai montrée auparavant. Il y a d'autres systèmes aussi très intéressants. Lorsque vous faites une opération dont vous n'êtes pas très sûr du résultat, voici différents objets créés. Vous avez dans Edit Hold Ctrl H. Retenez bien ce raccourci clavier parce que je pense que c'est celui-là que vous allez le plus utiliser. Ctrl H. Maintenant, je vais supprimer simplement en sélectionnant et en faisant Supprimer au clavier. Différentes tipotes. Et puis j'estime que j'ai fait une erreur. Edit Fetch, Alt, Ctrl, F. Es-tu sûr? Oui. C'est une sauvegarde temporaire quand moi j'en ai envie. Il faut savoir que ces fichiers que vous venez de faire avec Edit, Alt et Fetch se retrouvent dans notre répertoire de l'utilisateur. Vérifions Utilisateur, Document, 3D Studio Max, AutoBack. Je retrouve ici « Alt » et le « bac ». Qu'est-ce que c'est que ça ?« Alt », c'est ce que je viens de faire. Imaginons maintenant que je me trompe. Je me trompe dans le sens où je me dis, « Bon, ben, bah, euh, c'est bien, non, tout ça, je vais supprimer, voilà. » Et je vais faire encore une tipote, mais une seule. « Edit euh, », je veux faire « Fetch », et en fait, je clique sur « Alt », je me trompe. Ah, et voilà. Désastre. Pas du tout. « File »,« Open ». Je retourne dans le répertoire AutoBack que je vous ai montré précédemment. Je ne demande pas de voir les fichiers max, mais tous les types d'extensions. Et je retrouve HoldBack, le troisième. Qu'est-ce que HoldBack Eh bien, c'était mon Hold avant mon erreur. Et je retrouve comme ça. Donc vous voyez, je pense qu'avec tout ça, il y a moyen de ne pas se tromper. Pensez-y dès que vous avez un plantage ou une fonction que vous n'êtes pas sûr de son intégrité, okay ou bien quand vous augmentez les valeurs euh, ou certaines petites choses, donc vous n'êtes pas très sûr tout à fait de la stabilité de votre matériel pour tester. Ce que nous sommes en train de faire pour le moment d'ailleurs. Voilà une des techniques c'est une sauvegarde temporaire, reset. Je pense que là, quand même, il y a moyen de faire. On va continuer donc maintenant notre environnement et nos vues et les objets. Alors, je crée un objet tipote, décidément heureusement qu'il est là, et je vais vérifier maintenant les différentes options que j'ai ici. En même temps, c'est un rappel parce qu'on les a quand même pas mal utilisées. Et on va se rendre compte qu'en fait dans Max, vous avez beaucoup de choses qui sont identiques. Si je clique sur le petit plus, maximise, alt w, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc je vais passer au dessus, ça ne sert plus à rien. Active Viewport, c'est choisir les vues que vous voulez activer. C'est exactement la même chose que le curseur de droite dans la vue. Première des choses que nous avons vues. Disable, nous ne l'avons pas vu. D. Ça, c'est assez intéressant, par contre, lorsque votre scène est vraiment, vraiment, vraiment trop lourde. On reste donc dans les options d'optimisation. Regardez, j'active cette vue avec le bouton de droite. J'appuie sur D. Disable. Si je reviens dans la vue Perspective avec le bouton de droite. Move sur l'objet, je bouge l'objet, vous pouvez remarquer qu'il n'y a strictement rien qui se passe dans cette vue. Il faut pour ce faire recliquer dedans pour l'activer, pour qu'elle s'adapte. Je recommence, la vue frontale est ici au-dessus, voilà, il n'y a strictement rien qui se passe. Lorsque je clique dessus, elle s'adapte. Alors ça c'est pas mal, parce que tout compte fait, ça me permet de geler si on veut une vue. Disable. Le raccourci clavier, c'est tout simplement D. Okay. Donc ici, Disable Viewport. C'est pour geler le rafraîchissement de la vue. Continuons. Show Statistique, nous l'avons vu, c'est au clavier qui nous permet de voir le nombre de faces, etc. Show Grid, G. View Cube, c'est pour personnaliser. La manière que windows euh, windows 3d studio max utilise euh, ce genre de choses ok que généralement bon on laisse ça pour les architectes ou autres c'est très peu utilisé dans la production certains bien mais on peut considérer que c'est moyennement efficace étant donné que nous, nous allons personnaliser notre vue avec une caméra en termes de production l'orientation de ce dvd et surtout de travailler en termes de production néanmoins ça nous empêche de le voir on peut travailler la vue Home. Donc là, ce sont les raccourcis qui nous permettent d'y revenir. Voilà. Perspective. ViewCube. Home. Voilà. Vous voyez, donc à chaque fois, je pense que le plus simple, c'est de cliquer et de bien regarder comment cela fonctionne et d'apprendre à apprendre parce que, somme toute, okay, c'est vraiment pas très compliqué. Il y avait un autre système qui était un système de roulette. Shift W vous permet de le voir et de le placer. Ça permet de revoir les anciennes vues et les anciennes configurations. En effet, il n'y avait pas de Undo. Donc, si je clique ici, voilà. Donc, sur la petite fenêtre là, je vois comme ça les anciennes vues qui étaient auparavant faites. Bien. Je remets. Ok. Je clique pour le mettre là. Donc, Shift W. Alors zoom, ben c'est pour zoomer. Ça, c'est pour avancer progressivement. Je vais quand même remettre correctement par rapport à home. Voilà. Walking, c'est pour avancer. Voilà. De cette manière. C'est un peu particulier. Disons que c'est surtout euh, pour les architectes. Donc centre, c'est pour recentrer. Euh, Excusez-moi. Donc je vais remettre Shift W. Pan, c'est le panoramique. Orbite, c'est pour tourner autour. Ok. Et pour euh, tourner de cette manière. Bon, généralement, je peux vous dire qu'on utilise le bouton du milieu Alt, Alt, Control pour zoomer. Ok. Panoramique, comme je vous ai montré. Shift pour bloquer, etc. Donc cette vue est plutôt utilisée pour les architectes. Et d'ailleurs, dans cette version, ils l'ont enlevée parce que ce système était bloqué là. Configure, nous avons vu quoi Nous avons vu l'adaptative dégradation. Le layout, c'est la manière dont la vue est subdivisée dans l'environnement de 3D Studio Max. Ces frames, nous ne l'avons pas vu, c'est assez intéressant, mais pas pour le moment. Pourquoi Parce qu'on va le voir tout de suite après, puisqu'on le retrouve ici. Si vous cliquez sur le mot perspective, vous voyez la gestion des caméras, des lumières, perspective, orthographique, et on peut rechoisir ces vues. En fait, cela permet tout simplement de basculer le mot perspective à un autre type de vue. Tout simplement. Bien. Viewport clipping, je vous l'avais montré auparavant, ce qui permet de entre guillemets d'optimiser votre vue pour ne voir qu'une tranche de ce qu'on désire de voir dans la vue. C'est une optimisation intéressante de la vue, souvent confondue avec un bug. C'est simplement pour voir une tranche de la vue. Très intéressant quand vous avez comme ça une scène avec énormément d'objets. Pour le mettre jusqu'à l'infini, vous mettez les deux flèches, le plus en haut ou le plus en bas. Tout simplement. Je désactive Viewport Cliffing. Revenons maintenant au Chaussée Frame. Le Chaussée Frame est très intéressant parce qu'il vous coupe la vue. Alors Pourquoi il me coupe la vue ben Il se met par rapport à l'image qui va être réellement renderisée. En effet, vous imaginez... Comment comprendre le cadrage de la scène qui va être rendue si je ne vois pas ce qui va être sauvé Show, voir l'image sauvée. C'est totalement différent. Voici ici mon environnement de 3D Studio Max, mais cet environnement s'adapte par rapport à la proportion de la vue, que l'on peut personnaliser à souhait. Mais ça ne correspond pas au rendu. Pour faire un cadrage correct, je vous conseille toujours de cliquer sur le nom de la vue, généralement caméra par la suite, et Activer l'option Show C Frame pour vraiment voir ce qui va être calculé au rendu final. Les annulations de la vue. Alors, les annulations de la vue sont assez intéressantes. Je sais bien que chaque fois que vous faites une modification, vous savez tout ce que c'est CTRL Z. Par contre, les vues, c'est-à-dire ces manipulations-ci, c'est Shift Z ou Shift Y pour les restaurer. Autrement dit, voilà pourquoi je n'utilise pour ainsi dire jamais la roulette avec ces options de revenir en arrière sur les vues. Ok. Parce que je trouve ça un peu laborieux, mais enfin soit. Shift Z. Je continue. Donc les endos les voici. Ça sont différents types de vues que nous verrons par la suite. Active Shade, Shape sont des autres choses, des autres propriétés que nous verrons après. Le plus intéressant c'est ici Smooth Highlight, Wireframe. Bien sûr, nous avons vu les raccourcis clavier pour ces deux types d'affichage, qui est simplement F3. Transparency, non Simple, Best. D'autres styles de visualisation, Arrière-plan ou un nouveau venu de 3D Studio Max 2010, les options de... où on voit les erreurs de modélisation, mais pour ça, il faut bien comprendre comment fonctionne un objet. Alors, ici, dans 3D Studio Max, on peut voir différentes choses euh, en temps réel, comme par exemple les ombres ou autres. mais pour ça, il faudrait faire les lumières. On viendra donc par la suite sur ces aspects transparents, X-View, Viewport Background et lumière. Voilà pour ce qui est, on va dire, des manipulations des vues. On retrouve tout ça ici aussi. Vous pouvez sans aucun problème dans les vues 3D avoir des options de walk through. Bah ben voilà, nous y voilà, on n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois différentes choses. Un changement de focale. Alors, ça, très attention. En effet, la vue perspective a une focale et on voit que les déformations sont des fois un peu bizarres. Si vous exagérez sur les focales, vous obtenez une déformation énorme. Qui empêche de vous rapprocher de l'objet et de modéliser. Reset. Voilà. Par défaut, la focale est intéressante pour une scène globale, c'est-à-dire une vue d'ensemble. Lorsque vous allez travailler et modéliser un objet, vous allez avoir aussi des déformations. Même s'il n'y paraît pas, les déformations sont trop importantes pour modéliser correctement un objet. Pour éviter d'avoir une focale, qui est faite pour une vue d'ensemble. Et lorsque vous voulez modéliser, vous voyez que vous avez une déformation du bec verseur. Donc la déformation, on la voit bien, elle est ici. On a comme ça une perspective qui déforme okay, à cause de la focale qui est beaucoup ici euh, trop grande dans ce cas-ci. Donc on a une déformation. Pour ce faire, configure. Et vous avez perspective user view. 45. Si je mets le chiffre 20, c'est beaucoup plus proche de la réalité en termes de cadrage rapproché okay, d'un objet. Ça correspond à une focale de 80 ou autre en caméra. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on remarque que j'ai nettement moins de déformation qui est due à la perspective l'écrasement est beaucoup moins rapproché et on peut comme ça travailler beaucoup mieux okay. des objets en se rapprochant et c'est beaucoup plus fidèle pour la modélisation ne pas oublier que vous pouvez sauver save active perspective view ce type de choses pour vous éviter par exemple de déformer okay. ou de changer de trois paramètres non voulus ok view Restore et on retrouve comme ça la vue perspective qui était sauvegardée auparavant. Ces icônes sont différentes si vous êtes dans une vue 2D. En effet, si je vais sur la vue frontale, vous remarquez que c'est totalement différent. On retrouve la vue panoramique, le cadrage sélectif, zoomer ou dézoomer, etc. Mais bon, les raccourcis clavier sont beaucoup plus intéressants. Z pour recadrer toutes les vues automatiquement. Reset Layout. Voilà. Donc, ça, ça nous permet comme ça de naviguer déjà un peu mieux en très peu de temps. Hein. Donc, en très peu de temps, on manipule et on manipule les vues et vous pouvez comme ça maintenant manipuler vos objets. Pour rappel, Move, Rotation, Scale, toujours central. Alors, justement, on va attaquer maintenant la théorie des géométries. Très important. Okay, la théorie des géométries et de pourquoi il est déconseillé de faire ce genre de choses. Et ce qui va nous, nous obliger à manipuler et à comprendre un peu mieux toutes ces icônes qui sont là au-dessus. Bien, nous avons vu l'optimisation des vues, les objets 3D, les trois petites choses en manipulation, les transformations. Mais en fait, qu'est-ce que la 3D ben, Ça, c'est une vue 3D. Mmh, très bien. Un objet 3D. D'accord mais de quoi est constitué cet objet 3D Alors, ça, c'est une des parties les plus importantes de cette formation. Je vais enlever la grille et je vais agrandir la vue. G pour enlever la grille, Alt W pour agrandir la vue. J'ai ici une tipote. Mais qu'est-ce qu'une tipote ben, Nous savons, si j'appuie sur F3, que je vois son filaire. Si je réappuie sur F3, je vois son lissage. Et pour voir le filaire en même temps, j'appuie sur F4. Son filaire est une subdivision que je peux rajouter avec ses segments. Bien. Cet objet tipote est simplement une primitive standard, rien d'autre. C'est constitué de choses un peu particulières. Ces choses particulières ne sont pas très compliquées. C'est des points, des segments, des points, segments, points, et d'une face triangulaire. En effet, chaque objet est constitué de différents triangles. Mais pour faciliter la tâche, nous voyons généralement des faces carrées. Sachez qu'elles sont constituées de deux triangles. Cette géométrie est constituée donc de points, de sommets, vertex, voilà, trois, et des segments. Remplis, on obtient une face triangulaire. Ces deux faces triangulaires nous donnent une face rectangulaire. Il y a aussi différentes ouvertures. En effet, 3D Studio Max et sa tipote, par exemple à des formes ici qui sont complètement ouvertes. Tout cet amas d'informations, points, segments, etc., est contenu dans un espace-objet. Cet espace-objet, c'est lui qui subit les transformations. Ça, c'est important. C'est très important. En effet, c'est l'espace-objet qui subit les transformations. Dans cet espace-objet est contenu différents points, segments, donnant une forme à une géométrie. Cette forme étant une tipote. Cet espace-objet subit tout ce que vous faites avec position, rotation et échelle. Ceci est très important. On peut le visualiser d'une manière schématique. Comme je viens de le dire, vous avez ici une vue schématique qui est dans 3D Studio Max. Schematic View. Il vous symbolise la scène d'une manière schématique. Voici la tipote. Non, voici l'espace-objet de la tipote qui contient, regardez, la base objet-tipote. Ceci, c'est l'amas de points. Et ceci est l'espace-objet, c'est-à-dire la théière. C'est deux choses bien distinctes à bien comprendre pour toute la théorie 3D. En effet, on verra par la suite qu'on peut manipuler les points et manipuler l'espace-objet. Direz-vous quelle est l'importance de ce fameux espace-objet, de toute cette théorie ben, Nous allons voir maintenant la première partie des bugs qui puissent arriver. File, Reset. Je vais créer une boîte. Créer tout simplement une boîte, ce n'est pas très compliqué, vous cliquez sur Box, vous créez la première face et vous montez l'objet. Lorsque vous faites ce genre de choses, le pivot relatif aux transformations se trouve à la base. Le pivot, cursor de droite move, c'est là où s'attache le point de transformation, c'est-à-dire les rotations, la position et bien sûr l'échelle. Très bien. Il est tributaire de l'ordre de création. En effet, le pivot est à cet endroit. Regardez, je fais la boîte et maintenant je descends. Le pivot se trouve à l'endroit au-dessus. J'enlève la grille pour une meilleure visualisation. Pour rappel, première face créée et l'élévation. Première face créée et l'élévation. La première face créée, c'est là que le pivot va venir se mettre, c'est-à-dire le point de référence pour la création. En me direz-vous, oui, et quel est l'intérêt de tout ça ben C'est très important. En effet, lorsque je vais sélectionner un objet, je vais lui demander qui suive automatiquement l'autre. Cette notion, c'est ce qu'on appelle la notion d'enfant-parent. La notion d'enfant-parent, c'est dire qui va suivre qui. Alors, c'est important, on viendra par la suite sur la notion d'enfant-parent, puisque ici je suis en train de vous parler de l'espace objet. Alors, un peu de théorie, que diable, parce que c'est important. Je vais demander que cette boîte suivent et soit enchaîné, c'est une liaison qu'on verra par la suite, à son parent. Le principe est très simple, vous sélectionnez l'enfant et vous allez chercher ici les chaînes. C'est le tout premier icône d'une série qui va suivre. Le fait de cliquer dessus, vous maintenez la pression et lorsque le pointeur de souris change, ça veut dire que c'est valide. Lorsque le pointeur de souris affiche une croix, la forme n'est pas valide. En effet, l'enfant ne peut pas être son propre parent. Là, il n'y a strictement rien. Et là, c'est valide. Le pointeur change. Lui et son parent. Lorsque je tourne, l'enfant suit. Lorsque je bouge, l'enfant suit. Lorsque je change d'échelle, l'enfant suit aussi. Il est à noter que là, je change d'échelle d'une manière non homothétique, c'est-à-dire sur un axe ou deux. Proportionnel. Voilà ce qu'il ne faut jamais faire, c'est changer l'échelle sur un axe. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Lorsque vous allez animer et que vous faites des liaisons enfant-parent, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Vérifions. Je vais créer une boîte du haut vers le bas. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Je vais dupliquer cette boîte. Move, j'appuie sur Shift majuscule et je sélectionne Z et je déplace tout simplement je vais faire une copie. De voilà, deux copies. Je sélectionne tout et je duplique à l'horizontale. Encore une copie. Regardez bien les différences de manipulation. Je vais prendre cet objet et je vais aller dans modifier. Nous l'avons déjà fait pour augmenter les segments de la tipote. Je vais changer simplement son épaisseur. Visuellement, on a l'impression que je change d'échelle, pas du tout je change la disposition des vertex à l'intérieur, c'est-à-dire la création de l'objet à l'intérieur de son espace-objet. C'est un peu différent de la manipulation que je vais faire par la suite. Observons, ici je transforme l'espace-objet. Scale. Je fais un changement d'échelle non homothétique, à ne jamais faire. Mais bon, voilà, ce que je fais est vraiment une erreur. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais, jamais faire. Visuellement, vous ne voyez pas de différence. Et pourtant, regardez maintenant, je vais faire une liaison enfant-parent. Pour rappel, je prends l'enfant et je vais l'enchaîner à son parent. Je maintiens la pression et quand le pointeur change, je lâche. Je maintiens la pression quand le pointeur change, je lâche. Je fais pareil. Je fais donc une hiérarchie ici, l'enfant-le parent le parent et le grand-parent. Je vais maintenant faire une rotation. Je tourne, il n'y a pas de souci. Je tourne mon objet. Regardez ce qui se passe. La déformation de cet objet. Que se passe-t-il En fait, c'est très simple. Je vais déplacer ceci pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà. Ce qui se passe, c'est ceci. J'ai changé l'échelle sur cet axe. Si j'ai changé l'échelle sur cet axe ici, eh ben, ça influence aussi celui-ci. En effet, le fait de changer l'échelle de mon objet, quand je bouge, ben, les enfants suivent, quand je tourne, les enfants suivent. Eh ben, le problème, c'est que le changement d'échelle influence aussi, donc, sur le même axe de changement d'échelle, j'obtiens un écrasement de l'enfant. Et il en est pareil pour lui. L'enfant ici subit sur le même axe un écrasement et on obtient cet aspect un peu bizarre. Et c'est de pire en pire quand je vais tourner. Voilà ce qu'on obtient. Alors que de l'autre côté, rien du tout. Parce que je n'ai pas modifié les espaces objets. Il est donc très important pour éviter ces problèmes de ne pas modifier l'espace objet d'une manière non homothétique, c'est-à-dire en termes d'échelle non proportionnelle. Lorsque vous bougez, vous ne bougez pas la boîte intérieure, vous bougez l'espace objet. J'ai ici dans ma scène 6 objets. Je vais dans la vue schématique. Si je demande Base to Object, j'ai ici les espaces objets de chacun. Ce qu'ils contiennent est leur liaison enfant-parent. Ceci est les liaisons enfant-parent. C'est l'espace-objet qui les influence et chacun a sa propre boîte. Nous venons de voir la théorie de l'espace-objet et surtout à ne jamais modifier son échelle. Alors, l'espace-objet contient quoi ben, je reviens un peu à ma tipode et donc voilà mon, mon espace objet, donc la quadrature qui est ici. On pourrait demander éventuellement de voir ou de ne pas voir cet espace objet. C'est une des possibilités. En effet, si je viens sur Configure, vous pouvez demander de ne pas voir. Use Selection Bracket. Voilà. Et vous ne voyez plus l'espace objet. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de sélectionner l'objet. C'est un choix. Je répète ici, Configure. Use Selection Bracket, voir ou ne pas voir la quadrature de l'espace objet. Bien, alors cet objet est une tipote Oui, me direz-vous, mais quoi d'autre ben Écoutez, je vais prendre cette teapot et je vais dupliquer la tipote. en simple copie. Voilà, j'ai dans ma scène quatre objets. Un objet primitif dans lequel je peux modifier sa taille, son nombre de segments. F4 pour voir un peu mieux de quoi je parle. Et puis j'ai d'autres copies. Lorsque vous faites curseur de droite, vous pouvez convertir dans différents types d'objets. J'ai quatre propositions mesh, poly, patch, nerfs. Je vais donc rajouter une tipote. Pour pouvoir voir les quatre propositions. Cet objet est un objet primitif. Je peux donc accéder à sa construction. Mon premier objet, sans trop réfléchir, je vais le convertir en editable mesh, c'est-à-dire en maillage éditable. L'autre, le convertir en poly. Et je continue comme ça ma conversion. En patch. Et je continue en orbs. Je vais enlever la subdivision et je vais faire ici rapidement une observation globalement, nous ne voyons strictement pas grand-chose de différent. Par contre, si j'appuie sur F3, ah, c'est autre chose. J'ai ici une interprétation différente en mode filaire. Mon objet primitif, quant à lui, ne sait pas trop quoi en faire. On retrouve le nombre de segments, la taille. Bon, on retrouve donc la base même de la création. Je vais le supprimer. Ce qui m'intéresse, c'est ces quatre autres types d'objets. Généralement, dans la production audiovisuelle, nous travaillons en objet poli. Pour rappel, c'est le second. L'objet mesh était pour le départ du jeu. Il tend à disparaître de plus en plus okay, en termes d'objets pour la production audiovisuelle. Le patch est un objet surfacique. Ah, voilà, tiens, un nouveau mot. En effet, vous avez ici des lignes. On voit les lignes qui sont voilà, et qui déterminent euh, la distribution d'une peau, d'une surface, d'où le terme objet surfacique. Un peu comme les ailes d'un avion, où l'intérieur euh, est simplement une armature métallique, où on tend un tissu au-dessus. Voici les lignes, et la peau vient se tendre au-dessus, partant des segments de ligne en ligne. Cette peau va venir se remplir et aller de ligne en ligne. Partant de cette théorie, je peux considérer que j'ai ici une peau, encore une autre, et donc une, deux, trois, quatre, etc. C'est etc. un objet surfacique. Le Nurps, ah, le voici le Nurps. Le Nurps, ce n'est pas pareil du tout. C'est un objet aussi surfacique, mais piloté de l'extérieur. Piloté de l'extérieur. Alors, on va regarder un peu ces objets. Le nerf, c'est surtout utilisé pour le design. Le patch est utilisé aussi pour le design et de temps en temps pour l'animation. Nous allons nous plus nous concentrer sur l'objet polygonal parce qu'il est orienté euh, animation, effets spéciaux, vidéo et correspondra plus à notre chaîne audiovisuelle de production que les deux autres objets. Qui plus est, on peut quand même avouer que Max n'est quand même pas reconnu pour la modélisation nerfs. Ben, néanmoins, ça ne nous empêche pas de voir sa théorie comment fonctionne l'objet NURPS L'objet NURPS, lui, est aussi un objet surfacique, mais dont la surface et la peau est tributaire de la ligne, mais surtout des points et des poignées qui peuvent le manipuler. En effet, si je prends un point qui est ici et que je déplace à cet endroit, la peau va avoir une tension plus grande à cet endroit et je vais obtenir une souplesse. Vérifions. Je vais basculer en mode point de surface, par exemple. Je vais prendre ici, je vais le mettre en affichage pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà. Et je vais essayer de manipuler ces points de surface. Je vais bouger et vous remarquez que la peau, la tipode se déforme vraiment d'une manière très 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 souple. Mais que se passe-t-il en fait Mais il se passe des choses, euh, je veux dire, un peu bizarres dans, dans, cet dans cet objet. Ok, je vais faire ceci. Voilà. Et je ne m'occupais que de la poignée et de, du bec verseur pour le moment. On va. Voilà s'occuper de ça. Alors si je bascule sur F3 avec F4, je vois ici la triangulation qui se fait d'une manière automatique. En effet, vous ne contrôlez pas du tout la subdivision de l'objet nurbs. Si je bouge. On va remarquer que la subdivision est non contrôlable. Donc je vais prendre point par point. Voilà, et j'ai des triangulations qui se font et qui ne sont pas contrôlables. Voilà, on voit bien ici les dégâts que ça produit. Voilà, on voit très très bien ici des problèmes de triangulation de face. Le est intéressant en termes je veux dire, de modeling de design, mais pas en termes de contrôle de ses composants points. D'ailleurs, on contrôle ça par rapport à une coquille extérieure. Bon, de toute manière, le c'est est un objet que nous allons oublier pour le moment. Au revoir le nerf Je reviens à ma grille surfacique. Donc l'objet patch, comment il fonctionne lui alors l'objet patch, lui, c'est différent. Nous avons ici des points qui sont à l'extérieur avec des tangentes. En fait, les points qui sont à l'extérieur, ce n'est pas tout à fait une coquille, c'est plutôt une gestion de la tangente qui me permet de tirer ou non une peau, vous voyez, comme une courbe de Bézier. Très bien. C'est-à-dire qu'entre ce point et la tangente qui tire par là et ce point et la tangente qui tire par là la peau a tendance à sortir c'est donc bien une gestion de peau on peut prendre le point qui est directement sur la surface et tirer Par contre, la triangulation n'est pas non plus toujours aisée à contrôler. Ça donne une certaine souplesse, mais ce n'est pas forcément une technique judicieuse pour contrôler la modélisation. Direz-vous, il n'en reste plus que deux. Pour ce que nous allons faire, oui, je dirais même qu'il reste plus qu'un. La différence entre le mesh éditable et le poly est notable. En effet, lorsque je prends un point. Ici, que je le bouge, je me rends compte que en fait, c'est tout à fait linéaire. Bon, là, je n'ai plus de souplesse du tout, parce que je suis en maillage éditable. Je n'ai pas d'honneur, je n'ai pas de souplesse, je n'ai rien du tout. Les faces sont triangulaires. Donc là, ce sont les segments, les faces sont triangulaires. Voilà. Si vous supprimez un point, vous supprimez l'intégrité même de l'objet et vous avez comme ça un trou triangulaire. Pour recréer une face, vous devez faire par triangle. Donc vous êtes obligé, ce n'est pas le but du cours bien sûr, mais de recréer des faces par triangulation. C'était une technique qui vient du jeu où le nombre de faces et tout est assez important. Et on obtient comme ça des triangulations, enfin soit. Je vous dis pas, c'était assez laborieux. Supprime. Et le poly, me direz-vous Eh ben le poly tire son nom tout simplement de ceci lorsque je prends un point, je peux avoir des faces ayant plusieurs côtés. Je vous dites ben alors ça c'est génial, ben, c'est son nom polygone. En effet, parce que l'objet peut avoir des faces ayant plusieurs côtés, c'est-à-dire polygonal. D'où le nom de l'objet poli. Alors l'objet poly, cool. Alors l'objet poli, bah, quant à lui, euh, semble très intéressant, puisqu'on se dit bah, je n'ai plus de triangulation et tout. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, sachez que les triangulations existent toujours. Ne vous occupez pas de ce que je fais, mais je vous le montre, regardez. Donc en fait, dans les objets, c'est toujours des faces triangulaires, que ce soit le NURPS, le poli ou le mesh. La seule différence, c'est ce que vous, vous contrôlez. Voilà le principe du polygonal. Le polygonal, c'est vous donner un filtre, un, je veux dire uniquement des contrôles personnels. Mais sachez que c'est toujours des triangles, quel type d'objet que vous fassiez. C'est toujours, toujours, toujours des triangulations. Nous l'avons vu avec le Nurse, nous le voyons avec le Poly et nous l'avons avec le Mesh. L'avantage du Poly, et c'est l'objet que nous allons utiliser, c'est que ben, ça facilite le modeleur, euh, le, la personne qui travaille dans l'intégrité même de l'objet, parce que justement, ça évite d'être pollué avec cette triangulation. C'est beaucoup plus aisé pour créer. Et tout ça est bien sûr contenu dans l'espace objet. Voilà donc cette théorie des objets polygonales. Et pourquoi leur terme Simplement parce que les faces peuvent avoir plusieurs côtés. Notre formation on va s'orienter surtout sur l'objet poli. Mais vous allez comprendre par la suite pourquoi vous aurez ce type de question. Objet poly, éditable, mesh, donc un maillage éditable constitué de triangles ou éventuellement un patch. On peut quand même considérer que Max, en termes de surface NURBS, ce n'est pas le meilleur. Bien, dans ce chapitre, qu'est-ce que la 3D Il euh, y a aussi un truc très important, c'est que Max 2010 est orienté entièrement polygonal vous allez avoir des tas d'outils qui vont vous dire, écoutez, désolé, mais cet objet n'est pas poli. Alors ce n'est pas son éducation, bien sûr, c'est son type d'objet. Pour rappel, les objets polygonales, je crée un objet, je convertis en objet poli. Et ce type d'objet peut recevoir un peu et rapidement tout ce qu'on veut. En effet, si je vais chercher une image, je peux directement lui déposer dessus. Si je la sauve, euh, je peux vraiment l'intégrer et tout. Alors c'est pas le fait qu'il soit un objet poli, mais il y a plein de nouveaux outils que nous ne verrons pas pour la suite, mais qui sont par exemple propres euh, à l'objet polygonal. Exemple, il est impossible de peindre sur un objet mesh. On peut peindre que sur un objet polygonal. Et il y a différentes fonctions comme ça, comme certains rendus de surface map qui ne fonctionnent que sur l'objet polygonal, etc. etc donc faire très attention attention parce que là j'ai fait oh, petite bêtise. voilà donc faire très attention à ça que certaines fonctions ne fonctionneront forcément que sur l'objet polygonal bien on voit et on s'en rend compte maintenant pourquoi j'insiste tant sur notre apprentissage du modeling sur les objets polis et pas les autres puisque max est de plus en plus orienté vers ce type de géométrie alors une fois que vous avez euh, créé les géométries, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Nous avons vu enfant parent et puis on va essayer de voir un petit peu tout cet environnement de 3D Studio Max. Okay et euh, bah, différentes choses comme la sauvegarde, la manière de voir aussi certains menus et de trois petites choses. Alors votre objet polygonal est fait ici et on pourrait voir aussi ce qu'on a comme contenu dans la scène. Je vais faire plusieurs objets, donc move. Je vais dupliquer. Objet poli. Très bien. Je vais recréer une tipote. Donc, je rappelle créer, modifier, créer, modifier. Ok. J'ai donc deux objets polis et un objet primitif. Bien, bien, bien. Je vais ici dans euh, propriétés. Donc, j'ai cliqué sur l'icône ressemblant à max. propriétés, Summary info. Et que se passe-t-il Je vois qu'en tout. J'ai un nombre de faces, de points, ma mémoire physique utilisée et la mémoire virtuelle par rapport à ce qui me reste de libre. J'ai un objet typote, deux objets tipot, trois objets tipot. Le type éditable, éditable, tipot, c'est-à-dire objet primitif, objet éditable, en poly. Et on a comme ça différentes informations. Il n'y a pas de matériau, c'est-à-dire que bah, c'est un matériau standard. Il reçoit l'illumination, il, il ne génère pas de caustique, et tout ça sont des petites choses qu'on va voir. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de bien se rendre compte que via ce menu, vous pouvez avoir le nom des objets, le type d'objet, voilà pourquoi j'insistais sur les autres, le nombre de vertex, le nombre de faces. On verra par la suite toute cette partie que nous n'avons pas encore vue. La scène totale, le nombre d'objets. La mémoire physique utilisée pour tout l'environnement de Max et la mémoire virtuelle. Shapes, c'est de la 2D, lumière, caméra, assistant appelé helpers, déformateur spatial appelé Space Warp. Au total, de toute façon, je n'ai que mes trois géométries. Ok. Il y a une autre manière de voir le contenu de la scène, c'est H au clavier. Lorsque vous faites H au clavier, vous avez le contenu de la scène. Tipote, tipote, tipote. Vous n'avez pas ces informations du type polygonal ou autre. Le raccourci clavier pour H pour le contenu de la scène, c'est ici. Ces types d'objets sont des géométries. C'est pour ça que quand lorsque vous faites H, vous voyez les géométries. Si vous désactivez, vous ne voyez plus les géométries. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Géométrie, 2D, lumière, caméra, assistant, space warp, combinaison, groupe, etc. qu'on verra par la suite. Soit il vous le représente en mode d'icône, soit il vous le représente en termes de nom. Object, shape, light, caméra, assistant, etc. Notre aventure nous montrera après par la suite qu'on a donc autre chose que des objets géométriques, c'est-à-dire polygonales ou autres. Alors, créer un objet, tout ça, on nous a voulu les transformations de base, mais en savoir plus avec les transformations. Ici, nous allons voir quelques nouveautés avec 3D Studio Max 2010 et aussi ben, forcément les habituelles transformations de 3D Studio Max. Alors que ce soit un objet poli ou autre chose, c'est pareil bien sûr. Alors, lorsque vous créez un objet, vous avez votre espace objet. Cet objet se situe où Pour ce faire, vous appuyez sur W pour connaître sa position. Vous avez sa position par rapport à la grille. Si vous mettez les informations 0, 0 et forcément encore 0, il se positionne pile poil au centre de la grille. Lorsque vous sélectionnez l'objet et que vous êtes en position mou, vous voyez les informations par rapport à la grille. Vous pouvez déplacer avec les doubles flèches qui sont ici. Bien. Petite astuce aussi, si vous voulez multiplier par 10 les valeurs de la double flèche, vous appuyez sur CTRL lorsque vous cliquez sur la double flèche. Vous avez maintenant les informations par rapport à la grille de l'univers. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous avez les informations relatives maintenant. Exemple je vais remettre tout à zéro. Je mets relative à l'objet, j'avance de 10, j'avance encore de 10. Évidemment, si je me mets par rapport à la grille, je suis maintenant à 20 cm de la grille. Remarquez, ces informations, vous les retrouvez aussi à un autre endroit. Curseur de droite, move ici. Vous pouvez avancer encore de 10, et vous retrouvez maintenant 30 par rapport à la grille. Encore une autre manière d'avoir ce menu, curseur de droite sur l'icône déplacée. Et c'est pareil pour la rotation. Curseur de droite, 45 degrés. 45 degrés. 0. Curseur de droite sur échelle. Et là bien sûr, vous pouvez changer l'échelle de manière non homothétique, ce que je vous déconseille je vous conseille plutôt de travailler ce qu'on appelle en offset homothétique. 50% plus petit, 200% plus, plus grand. Bien. Ce qui est amusant à noter, c'est que l'échelle vous propose différents sous-icônes. À quoi cela sert Mais en fait, vous avez ce type d'échelle pour le cartoon, une sorte de squash. Une échelle non homothétique ou une échelle proportionnelle. Par défaut, l'icône est cette échelle proportionnelle. Vous pouvez remarquer que les icônes changent à chaque fois que vous cliquez sur le raccourci clavier relatif à l'échelle, R. Chaque fois que je clique sur R, je bascule comme ça sur les trois options du changement d'échelle. Bien. On va annuler comme ça tout ce qu'on a bien pu faire. Voilà. Ok. Je vais remettre ça au centre de l'univers. Je vais utiliser les techniques artisanales. 0. Vous allez comprendre tout de suite par la suite pourquoi je dis artisanal. 0. Bien, voilà mon objet est au centre de l'univers. C'est-à-dire au centre de la grille. Pour euh, déplacer mes objets, j'ai encore aussi d'autres options. Alors ceci est assez intéressant. Regardez bien, je prends l'axe X, je bouge. Je bouge sans arrêt. Je sais que c'est peut-être pénible aux vidéos, mais regardez bien. Je bouge sans arrêt. Je ne relâche pas la souris. D'ailleurs, je vous conseille de faire en même temps que moi. C'est un petit jeu, ça assez amusant. Je bouge sans arrêt. Je bouge sans arrêt. J'appuie sur F6 tout en bougeant. Et regardez, je change d'axe. F7, je change d'axe. F8, F8, F8. Ok. Que se passe-t-il En fait, c'est très simple. Lorsque j'appuie sur F5, je contrains un X. F6 à Y, F7 à Z et F8 c'est une bascule de deux axes en deux axes. Même si vous avez sélectionné les mauvais axes, et ça c'est génial parce qu'en termes de rotation, si vous bougez, vous dites aïe pas bon, F5 et directement je ne bougerai que sur un seul axe. Malgré le fait que j'ai choisi un autre, F6, F7 et F8, je suis deux axes en deux axes. Vous pouvez retrouver ces icônes un, éventuellement. Dans Axis contrainte. Pour obtenir ce menu, curseur de droite dans la zone où il n'y a rien, lorsque vous avez la main, par exemple en haut, Axis contrainte. F5, F6, F7, F8, 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 f 5 f 6 f 7 f 8 f 8 f 8 f 8 f 8 f 8 f 8 f 8 f 8 f 8 f et f okay. voilà, vais f mon f Voilà. Dans Max 2010, vous avez un nouvel outil, Transform Toolbox, qui se trouve dans Edit. Transform Toolbox est en fait une sorte de raccourci Object Center. Voilà, terminé. Voilà, donc je n'ai plus à faire 0 0 0, 0. Regardez, hop, Object Center. Qclone, c'est pour cloner directement un objet. Vous avez comme ça différents types d'objets. Tout simplement. Alors, on va observer les trois petites choses. Je vais supprimer mes copies. Je vais faire mon premier en faisant Q-Clone. Et j'observe dans Modifier. Créer, Modifier. Je prends celui-ci, j'appuie sur Shift et je clique sur Q-Clone. Et je positionne à cet endroit. Regardez bien la différence. Je suis sur Modifier. J'ai mon objet d'origine, j'ai ma copie et j'ai celui-ci. Il y a un icône en plus. Cette icône signifie que c'est une instance. Vous connaissez maintenant le principe Shift-dupliquer avec instance. Et bien en fait, Q-clone avec Shift signifie tout simplement faire une instance. Et ça, c'est le symbole d'une instance. Observons je vais changer la taille, le nombre de segments. Celui-ci ne change pas. Pour enlever une instance, il suffit de cliquer sur cette icône, Make Unique. À ce moment-là, je peux changer sa taille et d'autres paramètres. Il ne change plus. Voilà, centre. Supprime, supprime, centre. On a comme ça aussi une rotation automatique de degrés prédéfinis. 20 degrés. 10 degrés. 90 degrés ou personnaliser les degrés. On verra par la suite le changement d'échelle et le rapport par rapport à l'échelle. C'est une des nouveautés de 3D Studio Max 2010. Il n'y a pas à dire, mais vous avez vraiment le choix okay, pour manipuler vos axes et de modifier comme ça les échelles des objets. Petite astuce lorsque vous ne vous désirez pas modifier un objet sur un de ces axes, Vérifions, je vais créer une tipote. Et je vais non pas dans créer, ni modifier, mais dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, donc 1, 2, 3e icône, je répète, vous avez ici l'icône créer, qui permet de créer des géométries. Modifier, c'est-à-dire les constituants, la taille, le nombre de segments, etc. Et la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi la hiérarchie, c'est en fait ce qui n'est pas manipulable en termes d'objets éditables, comme par exemple son pivot. Le pivot, c'est justement cet axe de référence, qui est théoriquement tributaire de l'historique de création. Les informations cinématiques inverses, un peu tôt. Et les liens infos. Ça, ça m'intéresse. Les liens, c'est quoi Mais Les liens, nous allons y aller tout de suite. Je bloque, par exemple, X, Y. Même si je prends X, Y, je ne peux que bouger en Z. Regardez, je prends X et je ne sais strictement rien faire. Et on peut, comme ça, bloquer les rotations, bloquer l'échelle. Ah, c'est bien ça. Comme ça, on ne sait rien faire. Et c'est bien fait. Bloquer le mouvement. Move, je ne peux bouger que sur deux axes. Et la rotation ne peut se faire que sur Z. Bloquer. Link info dans hiérarchie. Alors bloquer un axe, oui, mais bloquer un objet bah, Par exemple, continuons avec notre tipote. Voilà, je crée les tipotes, très bien. Je sélectionne cette tipote et malencontreusement, je clique sur un clavier et je ne sais pas trop ce que je fais et j'essaye de sélectionner et de bouger autre chose et c'est impossible. Et ça, ça arrive sans arrêt. Vous venez de cliquer sur la barre d'espace et regardez. Le petit Can ici enclenché. La barre d'espace gèle une sélection. Et ça, souvent, c'est assez dramatique pour les gens qui viennent de produits autres où la barre d'espace est tout simplement la manipulation généralement OK dans la vue. Et bien voilà, dans Max, la barre d'espace, c'est bloquer mon objet. Donc faites attention un peu à ça. Ça arrive souvent. Alors, ben, tant que je suis à la sélection, justement, ou bloquer une sélection, comment je peux sélectionner Vous remarquez que je sélectionne toujours avec une fenêtre. Ici, je sélectionne. Toutes les tipotes. Pourtant, si je regarde bien, la tipote bleu ciel n'est pas englobée. Elle est tout simplement rencontrée dans mon cadrage. En effet, lorsque j'ai fait une sélection, j'englobe les tipotes, mais je rencontre celle-ci. Elle n'est pas englobée. Il y a donc une partie à l'extérieur de ma sélection. Néanmoins, elle est sélectionnée. Pourquoi Parce que cette icône est active. Rencontrée. Si je prends l'icône englobée, la typo bleue n'est pas sélectionnée. En effet, avec cette icône, il faut englober les objets. Autrement dit, si je fais ceci, la typo bleue n'étant pas englobée, elle n'est pas sélectionnée, tout simplement. Pour ça, il faut que j'aille englober tout mon principe. Alors la sélection c'est Q au clavier. Mais lorsque vous faites Q, vous remarquez que les icônes changent. En effet, vous avez différents types de sélection. Une sélection rectangulaire. Attention, englobante ou rencontrante. Une sélection circulaire. On verra par la suite, dans le cas du modeling ou de sélection de certains objets, ça peut être assez sympa. Une sélection par suite de segments, très particulier. Il faut pour ça revenir à la base et l'icône change légèrement en curseur, en croix. On ne voit pas ça très bien. L'autre type de sélection, plus judicieux je dirais, c'est le principe du lasso. Vous cliquez une fois et d'office le circuit de sélection se referme sur lui-même. Donc ça c'est quand même beaucoup plus simple que le précédent où vous devez faire une suite de segments et tenter à revenir au premier. Et après vous avez l'aérosol qui vous permet de sélectionner en survolant comme ça à la souris. Ok, très intéressant pour des points, moyennement intéressant pour les objets. Ce type de sélection se met en boucle lorsque vous appuyez sur différentes fois sur la lettre Q du clavier. Bien. On sélectionne comme ça différents types d'objets. Alors, on peut les sélectionner aussi différemment. Via la touche H, vous pouvez sélectionner vos objets et cliquer sur OK. À ce moment-là, bah, ils sont sélectionnés. On va basculer maintenant sur leur alignement. Les alignements dans 3D Studio Max, vous allez en retrouver plusieurs. Mais avant de commencer les alignements, il faut bien comprendre comment fonctionne un objet. Pour rappel, je vais faire une boîte, première face élévation. Alors pourquoi j'ai fait ceci ben C'est très simple. Lorsque la boîte est créée, imaginons que cette boîte est très personnelle. Voici. Par définition, son cœur est à gauche. Bien. Mais à gauche, pour qui Pour lui, ou la gauche, d'eux. Et là, on est face à un gros souci. Qu'est-ce que la gauche et la droite Pareil, en haut ou en bas En effet, si on considère notre terre, les gens qui habitent ici, leur haut, il est là, mais pour les autres, le haut est là. Et donc, on est face à une problématique, on ne va pas dire un incident diplomatique, mais quand même. Et pour Max, c'est pareil. Il n'y a pas de haut et de bas. Il y a des points maximum, des points minimum. Les seules choses que Max reconnaît dans nos géométries, c'est leurs points pivots, c'est-à-dire leur zone d'origine, pour rappel, en fonction de l'historique ou à la base des typotes. Il peut comprendre le centre des objets, c'est-à-dire les centres de la quadrature. Dans ce cas-ci il va faire fi du point pivot pardon et il va s'occuper simplement du centre de la quadrature. ou bien il va comprendre l'élévation et l'écartement. à ce moment-là par rapport au premier point, ce sera ce qu'on appelle le minimum et par rapport à l'écartement ou la création, c'est ce qu'on va appeler le maximum. Je pense que ce sera un peu plus compréhensif, par rapport à une petite pratique. Justement l'alignement maintenant. Ben voilà mon objet boîte. Regardez bien. Je crée et je monte. Je vais créer maintenant une tipote. Pour meilleure compréhension, je vais basculer en filaire. F3. Pour l'alignement, c'est pas très compliqué. L'objet tipote est sélectionné. Pour être sûr, j'appuie sur Q au clavier. Ce n'est pas la peine de vous mettre en modification, transformation, position, rotation, échelle, Q suffit. Et j'ai ici des tas d'icônes qui servent à l'alignement. Le tout premier est le plus riche, mais aussi le plus contraignant. Un objet est sélectionné, je clique sur l'icône, par la suite je choisis l'objet. Il faut pour ça que le pointeur de la souris change. Ne cliquez pas dans le vide, ça ne sert à rien, cliquez dans ce cas-ci sur le filaire. Il va vous proposer un alignement en X, Y ou Z au centre de l'objet par rapport au centre de la tipote. Current Object, c'est l'objet de base. Target Object, c'est l'objet cible. Dans ce cas-ci, la boîte. Si je mets minimum, c'est la face la plus basse. Si je mets maximum, c'est la face la plus haute par rapport à la création. Si je mets point pivot, point pivot, le point pivot de la tipote se repositionne au point pivot de la boîte. Si je mets maximum, le point pivot se retrouve au point le plus maximum. Si je désactive X Y, il fait ça sur la position Z. Si je mets X Y, je retrouve ça en XY. OK. J'aurais besoin que ce soit en Z, je recommence. L'objet sélectionné, alignement je choisis, faites très attention au curseur de manière qui change pour valider l'alignement possible. Point pivot, cette fois-ci uniquement en Z par rapport au maximum, c'est-à-dire il va monter. Ok. A vous maintenant de glisser automatiquement. Une petite astuce pour aller un peu plus vite est celle-ci. Regardez bien, je crée ma boîte vers le bas. Le fait d'avoir créé ma boîte vers le bas, je sais que mon point pivot est en haut. Bilan, plutôt que de choisir un alignement de cette manière, je vais prendre Quick Align. Alors le Quick Align, comment il fonctionne ben, C'est pivot, tout pivot. Important, d'abord l'objet, puis après l'objet target, c'est-à-dire l'objet cible. L'objet source, Quick Align, et regardez, je clique sur celui-ci, c'est pivot, tout pivot. Bilan en fonction de l'ordre de création. Vous voyez que l'ordre de création est très important. D'abord la première phase créée, puis je suis descendu. Bilan, le pivot de la boîte est ici, le pivot de la tipote est en bas. Voilà pourquoi l'ordre de création est important, surtout avec les outils alignés. Quand je vous ai parlé d'un objet 3D, je vous ai parlé des points. Oui. Je vous ai parlé des segments, des faces de l'objet polygonal. On va s'amuser déjà à naviguer un petit peu avec ce, ce principe de l'objet polygonal parce que j'en ai besoin pour comprendre la suite de l'alignement. Je vais donc convertir l'objet en objet poly et j'ai ici ses composants. Point, segment, ouverture, face polygonale, élément. Qu'est-ce qu'un élément alors j'en profite tant que je suis ici pour vous expliquer un peu l'élément. L'élément est un élément, tout simplement, qui n'a pas de point commun. En effet, si vous déplacez l'élément, vous remarquez que la tipote est un objet bien pauvre en modélisation. Il n'y a aucun point commun qui rattache ces quatre éléments. Ces quatre éléments sont dans le même espace objet polygonal, tout simplement. Je vais vous en demander d'en supprimer un, le couvercle. Et maintenant... Si je fais un rendu rapide, je vais me rendre compte que l'objet est vide. Pour faire un rendu rapide, ce n'est pas le but du cours, mais c'est une petite astuce quand même, majuscule Q. Et remarquez que l'objet est complètement noir. Alors ce n'est pas dû au fait qu'il soit dans l'ombre, il est vraiment transparent. En effet, si je demande de voir le Channel Alpha, on verra en théorie, l'objet est transparent. Autrement dit, l'objet est inexistant en information pixel. Direz-vous, mais pourquoi alors qu'on le voit On le voit parce qu'il essaye d'être gentil avec vous, mais théoriquement, il est inexistant. Comment cela se fait-il Les objets 3D, s'ils n'ont pas d'épaisseur, ils n'ont qu'une seule face. Et cette face a une orientation vers l'extérieur. Cette orientation vers l'extérieur qui reçoit la lumière, c'est ce qu'on appelle les normales. Ce qui permet à la 3D d'être optimisée de recevoir l'impact lumineux sur la surface. L'intérieur est aussi incompréhensible pour 3D Studio Max que dessus, dessous, gauche, droite. Tout ce qu'il peut comprendre, c'est ce qu'on appelle l'orientation des faces, c'est les normales. Soit, sachez que notre objet est rempli de normales. Les normales sont l'orientation tout simplement des faces. L'extérieur, qui va permettre de recevoir la lumière et de renvoyer un impact. La théorie des normales se verra par la suite sans aucun problème. Mais pour l'instant, j'ai besoin simplement de comprendre que chaque face a une orientation vers l'extérieur, et c'est ce qu'on appelle les normales, ça détermine l'orientation. Direz-vous, oui, et alors Mais alors, c'est très intéressant, parce que ça va me permettre de faire une petite pote. Et de regarder. Je vais choisir un alignement par rapport au normal. Je sélectionne d'abord l'objet et je choisis cette icône. Je maintiens la pression de la souris, donc le curseur de gauche, et je vois une flèche bleue. Ce n'est rien d'autre que la normale, ou je dirais la normale que je choisis parmi toutes les normales, c'est-à-dire l'orientation extérieure des faces. Et dès que vous en choisissez une sur l'objet source, vous cliquez sur l'objet cible et là vous allez avoir une normale. Vous maintenez la pression. Automatiquement, les deux objets s'alignent. Vous pouvez même choisir un éloignement en X, Y ou Z, voir son angle. Et si vous inversez les normales, ça va se retrouver à l'intérieur. Très utile comme ça pour placer par exemple des cornes sur euh, le front de quelqu'un. Ok ou une clanche de porte sur une porte, ou des éléments autres sur une autre géométrie. Je répète, vous allez sur alignement des normales, vous choisissez la normale, c'est-à-dire l'orientation de la face, qui reçoit la lumière et autres, vous maintenez la pression de la souris. Je clique sur la surface de l'objet cible, je maintiens la pression, je choisis la normale, je valide. Tout simplement. On peut choisir l'angle, et l'offset, c'est-à-dire l'éloignement. OK. Voilà par exemple un des systèmes d'alignement. On a comme ça plusieurs types d'alignement. Un alignement avec un menu nous donnant les notions de minimum, maximum, point pivot, centre, choisissant x, y, z. On a un menu quick align qui est directement pivot to pivot et un menu qui permet de choisir une normale et une autre normale. Si tout ça vous embête un peu, il y a aussi une option directement à la création de vos géométries. Exemple, une tipote et avant de créer votre tipote qui est, vous avez remarqué attaché à la grille, vous avez Auto Grid. Auto Grid, c'est d'utiliser tout simplement la normale comme alignement. Regardez, j'ai cliqué Auto-Grid et je fais maintenant une planète t Très simplement, sans aucun souci. Voilà, à vous de jouer en espérant que ce n'est pas contagieux. Bien, nous avons vu qu'on pouvait aligner des objets avec Auto-Grid. Autogrid, bah, c'était considéré les normales d'un objet, un peu comme une grille. Alors voici notre grille. Mais si cette grille ici ne vous plaît pas, vous pouvez en personnaliser une autre. À ce moment là nous ne créons pas des objets 3D, ni de la 2D, ni de la lumière, les caméras, mais nous avons des assistants. Les helpers sont des assistants. Dans les assistants, vous avez l'objet gris. Vous créez simplement une structure grille Cette structure grille vous pouvez la déplacer, la tourner, en fait, faites un peu ce que vous désirez. Alors on va voir comment on peut l'activer. Tout simplement, votre objet est placé dans l'environnement. Voici. Vous allez dans Tools, Grid and Snap, Active Object Grid. Directement, c'est cet objet qui est activé. Et si maintenant je crée les teapots, les teapots se mettent sur cette grille nouvellement active. Bien. Tools, Grid and Snap. Active Home Grid et vous réactivez la grille Home. Cet objet gris, lorsqu'il n'est pas activé, peut aligner à n'importe quoi. Exemple, je prends ma boîte, je reprends lui, j'aligne avec celui-ci, minimum, maximum, Centre, etc. Évidemment, le fait d'avoir fait une rotation, c'est pas très malin. Mais enfin, soit. Ce qui est assez intéressant, c'est ceci. Regardez bien, nous allons nous amuser un petit peu. Je vais supprimer les tipotes et les supprimer. Voilà. Donc j'ai sélectionné les supprimer, pardon. Et je vais maintenant, bon, nous l'avons fait un tout petit peu, hein. avancer dans la ligne du temps et cliquer sur auto -key. Je vais bouger cette grille et tourner la grille. Voici. Tools, Grid and Snap, Active Grid Object. Et la grille objet est animée. Je peux comme ça éventuellement animer une grille. Un peu grand lui. Voilà. et placer des objets par rapport à cette animation. Changer d'échelle avec le Toolbox. Alors le Toolbox, ben, c'est le nouveau qui est ici. Transform Toolbox. C'est une nouveauté de 3D Studio Max 2010. On a ici Size. Alors on va regarder. Par exemple, si je fais une boîte dont l'échelle euh, va être... Euh, allez, je vais faire une échelle facile à retenir. 50, tab 50, tab 50. Ok, j'ai donc une boîte de 50-50. Ok, je vais faire une teapot. Très bien. Je vais maintenant prendre cette boîte et faire Get. On a ici les tailles, get, tout simplement. Ok, si je fais set size, il reprend la taille qui est ici. Si je fais get, ok, maintenant il est trop tard parce qu'il vient de reprendre sa taille, évidemment. Par contre, vous pouvez remarquer que les tailles ne sont pas changées. En effet, ceci change la taille de l'espace objet. Faites très attention à ça. Bien, alors je vais mettre all get. Maintenant, je vais faire set size pour tout. Donc tout est à 20, c'est-à-dire x, y, z. En effet, j'aurais pu choisir lequel j'aurais voulu. Exemple sur z, je vais mettre 50 maintenant. Get. OK. Set size, il vient de le faire. OK, je ne vais plus m'occuper de ça pour le moment. OK, donc je vais remettre maintenant all. Set size, 50, 50, 50. Attention, la taille ici que je change, c'est bien la taille de l'espace objet. Si je fais get, je retrouve 50-50-50. Je reprends la tipote. J'ai donc eu la taille ici 50-50. Sur la tipote, si je fais set size, automatiquement la tipote se met de 50-50-50. Ce qui est un peu bizarre pour une tipote, parce qu'elle n'est pas très habituée à une quadrature. J'aurais pu dire, bah écoute, c'était uniquement euh, sur Z. Ok, set size. On va peut-être diminuer en Y. En Y, on va lui mettre par exemple 30. OK, set size. OK, on comprend un peu mieux. Donc c'est une manière de changer. On peut donc prendre une taille d'un objet existant et lui imposer un autre. Voilà, c'est euh, une des manières d'imposer une forme à un espace-objet. Attention, on est bien d'accord que vous ne modifiez pas la structure intérieure. Donc, on en voit bien ici l'importance de l'espace objet par rapport à la structure intérieure. Ça n'a rien à voir. Voilà, on a vu à peu près toutes les transformations, sauf le point pivot. En effet, le point pivot, vous pouvez aussi le modifier le centrer, le remettre à l'origine sur différents axes. Il y a différentes manières de travailler le point pivot. L'alignement du point pivot, généralement, se fait plus via la hiérarchie avec ici. Et ça, c'est ce que nous allons voir par la suite. Alors les transformations, les changements d'échelle, tout ça sont tributaires du point pivot. Le point pivot, lui, se modifie ici. Le point pivot est quelque chose de très important. En effet, si je fais une boîte du bas vers le haut, ou une tipote, je remarque que les transformations, c'est-à-dire position, rotation, échelle, se font par rapport au point pivot. W pour position, et je remarque toujours ce point pivot qui est là. Si je vais dans hiérarchie, maintenant nous l'avons vu, j'ai Affect Pivot Only. Le pivot peut, sans aucun souci, être placé dans l'univers. Si vous êtes en Affect Pivot Only, son affection, c'est-à-dire le fait de le bouger, de le transformer, de le tourner, est exactement pareil à un objet. Il va réagir de la même façon dans l'univers. Autrement dit, on pourrait par exemple être un quick align par rapport à la tipote. C'est assez amusant parce que ça voudrait dire maintenant que le pivot de la boîte est ici au-dessus de la tipote. Oui. Donc si je tourne maintenant ma boîte, ça tourne bien par rapport à l'alignement de la tipote. Affect pivot, on peut directement le recentrer, aligner tout l'objet ou aligner à l'univers. Attention, aligner à l'objet, il va garder l'orientation de l'objet, c'est-à-dire que mon objet vient de subir une rotation. Aligner à l'univers, il va l'aligner par rapport à l'axe de l'univers. Pour information, l'axe de l'univers est ici présent. X, Y, Z, et on retrouve bien X, Y, OK. Les axes qui sont ici, X, Y, Z. Généralement, on les laisse en Aligner to Object. Vous pouvez le faire un Quick Align avec lui-même. Ce qui, des fois, est un peu bizarre vu que c'est son propre pivot. Bien. Pourquoi alors justement lorsque je manipule les pivots je retrouve ceci En effet, j'ai l'axe de l'objet et puis je vois un autre pivot. Euh, Est-il possible de manipuler l'objet par rapport à son propre pivot Voici justement, nous venons de personnaliser notre pivot. Il serait très intéressant de comprendre un peu mieux les transformations par rapport à d'autres référents que l'univers. En effet, pour l'instant, je travaille toujours par rapport au référent de l'univers. On va faire un reset pivot pour qu'il se repositionne au centre comme avant. Nous allons voir maintenant non plus le principe de modifier rapidement des pivots, mais à quoi correspondent screen, world, parent, local, gimbal, grid, rocking, pick. Bien, voyons un peu mieux maintenant les autres principes des pivots ou en tout cas des axes de référence pour les manipulations. On va créer des boîtes. Du bas vers le haut. On va les dupliquer tout simplement Shift sur un seul axe. On va en mettre comme ça quelques-unes. Bien, l'ordre importe peu. Si je prends toutes ces boîtes que je fais une rotation, la rotation a lieu par rapport au centre du groupe. Par contre, si je modifie cette icône et que je choisis l'icône qui est en dessous, les rotations ont lieu par rapport aux pivots respectifs de ce que contient cette sélection groupée. Si maintenant je choisis le dernier icône, la rotation se fait par rapport au centre de l'univers. Observons, je déplace mes objets, je choisis maintenant une mode rotation. La rotation a gardé l'alignement extérieur. J'ai trois types d'icônes. Celui-ci c'est par rapport à la vue. Il est donc au centre de l'univers. Si je prends cette icône, c'est par rapport au centre de la sélection groupée. Si je prends cette icône, c'est par rapport au pivot respectif de chaque objet. Certaines fonctions trouvées ici, comme le centre respectif de chaque objet, font fi de ce qui est sélectionné ici. Important de ce type de cocktail. Vérifions maintenant. Nous allons faire tout simplement une boîte, une tipote, et cette boîte, je vais faire une rotation. Il n'est franchement pas facile de dupliquer la boîte par rapport à son prolongement, c'est-à-dire par rapport à son orientation locale. Pour ce faire, vous basculez en mode View, vous mettez en mode Local. À ce moment-là, il est très facile de le déplacer. En mode View, vous êtes par rapport aux axes de la vue, que l'on voit ici, alors qu'en mode Local, vous êtes par rapport aux axes locaux de l'objet manipulable et changeable avec les pivots. Donc c'est beaucoup plus facile en faisant Shift de faire un double en simple copie qui se positionne au-dessus. Si maintenant je fais une hiérarchie, pour rappel, enfant parent, attendez que l'icône de le pointeur de la souris change, et enfant parent. La hiérarchie que je viens de faire, c'était enfant vers parent, et puis j'ai fait enfant vers parent. Autrement dit, celui-ci est l'ancêtre, le parent, et l'enfant. Si je fais une rotation, le parent entraîne son enfant, et celui-ci entraîne tout le monde. Si maintenant je prends cet objet que je demande qu'il fasse une rotation par rapport à son parent, il va essayer de tourner, mais d'une manière un peu bizarre, parce que celui-ci le bloque et le contraint à son axe local. Vous devez choisir axe extérieur. Et là, automatiquement, il va tourner par rapport à son parent. Et c'est pareil pour lui, bien sûr. Là, il tourne par rapport à son parent. On voit donc la différence entre local, parent et bien sûr view. Toujours par rapport à ce type d'icône très important, référent extérieur, c'est-à-dire au choix qui est ici. Allons plus loin maintenant avec une simple tipote encore. View, Screen. Je vais faire un déplacement, Move. Qu'est-ce que le screen Le screen, c'est par rapport à la vue et votre orientation personnelle. Vous allez remarquer qu'il va s'adapter automatiquement. Bien. World, c'est l'univers. L'univers, par défaut, c'est le centre de la grille. World. View et World peut être semblable. Oui. On verra. N'oubliez pas que si vous changez, par exemple, échelle, il va se remettre par défaut en View, ce qui nous permet des fois de déplacer l'objet par rapport à son centre, à lui, mais de tourner par rapport à autre chose. En effet, il va garder, Move, Rotation, les paramètres que vous avez choisis. Pour les différents types de transformations. Position, rotation, échelle. Parent local. Gimbal. Alors lui, il est assez intéressant, surtout pour l'animation et en rotation. Observons, je suis en mode rotation, je vais me mettre sur le centre. Donc je vais me mettre par rapport à l'objet, tout simplement. Donc ça c'est au point pivot. Observez les rotations. Si je tourne l'objet, je ne sais pas en termes d'animation ou autre à combien de degrés j'ai déjà tourné. CTRL Z. A l'inverse, si je me mets en gimbal, je vois les proportions qui changent par rapport à ma rotation. Regardez, ce qui est beaucoup plus aisé pour venir le remettre. Il y a bien sûr d'autres informations plus importantes. En effet, observez l'angle ici X par rapport à l'autre axe Z. On voit qu'il y a un changement de proportion. Une sorte d'historique, si on veut. Alors que si je me mets en mode local, il reste toujours à la même proportion, c'est-à-dire il divise de partie égale le gizmo de sphérique de rotation. On n'a pas d'écrasement qui est dû à l'historique de rotation. Grid, c'est par rapport à la grille. Nous avons vu qu'on peut avoir des objets gris comme ça. Cela explique la confusion des fois de view et de grid. Working, c'est vous à créer l'axe. Alors walking, c'est une nouveauté qui est apparue à un certain moment, euh, la version 8 ou 7, je pense. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ça peut servir. Alors, ben, le working, il faut le créer. Si je fais par exemple une boîte, je vais venir dans ici et j'ai Edit Working Pivot. Voilà le Working. Je vais le mettre là par exemple. Un peu plus loin. Voici. Je prends mon objet, je fais une rotation. Working, extérieur, et il le fait par rapport à l'axe extérieur. Tout simplement. C'est un axe qui vous permet d'avoir autre chose qu'un objet ou autre dans la scène. Ceci dit, je n'utilise jamais personnellement. Et je fais d'autres choses. Je fais un reset. Bien. Alors quelles sont les autres choses que je fais ben, Ceci. Une boîte. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. Regardez bien. Tout en bas, pique, la boîte 1 est reconnue. Pic, la boîte 2 est reconnue. Pique, la boîte 3 est reconnue. Je crée une petite Rotation, axe extérieur, qui Boîte 1. La tipote tourne par rapport à la boîte 1. Boîte 2, la tipote tourne par rapport à la boîte 2. Boîte 3, la tipote tourne par rapport à la boîte 3. Ce qui est plus rapide, parce que je peux choisir comme ça les objets qui m'intéressent. Bon personnellement, j'utilise plus cette technique que le working, parce que le working, vous en avez qu'un. Vous voyez quand même l'importance de bien connaître tous ces types d'axes. Okay. Alors ça c'est pas mal parce que ça vous permet aussi d'aller même beaucoup plus loin que certaines choses. Euh, exemple, je vais aligner cet objet rapidement par rapport à l'autre. Je vais en faire un enfant parent. Je vais tourner. Attention. En local. Voilà. Et donc maintenant, si je tourne la tipote par rapport à la boîte 3, elle va tourner par rapport à la boîte 3. Et ça va suivre le parent. On peut comme ça s'amuser à animer des objets parents, etc., etc. Alors ça, je me suis déjà amusé pour différentes choses. C'est-à-dire pour une porte. Voici une porte. Voici par exemple sa charnière. La charnière va être connue comme axe de référence, pic. Voilà, tout simplement. OK. J'enlève la grille pour une meilleure lisibilité. La boîte qui est ici va tourner en rotation par rapport à la boîte 2 qui est sa charnière. Extérieur. Donc la boîte tourne par rapport à sa charnière, il n'y a pas de souci. Tout d'un coup, une explosion et la boîte tourne par rapport à son centre. Et elle laisse la charnière sur le mur. Bien, maintenant nous allons voir une des notions assez amusantes dans 3D Studio Max sauver, bah ben oui, forcément. Charger, oui. Fusionner la différence avec importer ou exporter. Alors Première des choses, euh, bon, on va créer simplement encore notre tipote parce que pour l'instant c'est de la navigation et c'est justement de, le principe et la philosophie de 3D Studio Max. Donc je viens de créer une simple tipote sans plus. Pour sauver cette théière, ben, ce n'est pas compliqué. Vous venez sur cette icône et vous avez Sauver sous. Et par défaut, il vous propose toujours le répertoire de l'utilisateur. Moi, je vais mettre ça sur mon bureau et je vais donner un nom. Voilà, rien d'original, tipote j'enregistre. Si vous faites par exemple une modification quelconque, un déplacement ou une modélisation, vous pouvez directement sauver sous et appuyer sur le petit plus. Lorsque vous cliquez sur le petit plus, automatiquement que fait-il En fait c'est pas très compliqué, si j'observe j'ai TIPOT et il m'a fait TIPOT01. Autrement dit, chaque fois que vous cliquez sur la, le petit plus, la théière va obtenir un numéro en plus. Donc 01, 02, 03, 04. Très bien. Maintenant, observons autre chose. Je vais prendre un fichier test, qui contient aussi une théière d'ailleurs, et je vais glisser sur le logiciel 3D Studio Max. Automatiquement, il est importé. Vérifions. Je vais annuler tout le contenu de ma scène en appuyant sur Reset. Je vais réduire l'affichage de 3D Studio Max. Je prends le fichier, je glisse, je dépose. Open file. C'est exactement la même chose que de faire ceci. Open, open. Sauf que dans ce cas, j'ai simplement glissé, déposé. Évidemment, c'est le même fichier. Ce qui est à noter d'assez intéressant, c'est ceci. Regardez, je prends le même fichier je dépose et je fais Merge. Merge signifie un peu fusionner. Lorsque vous êtes en mode Merge, vous pouvez glisser et placer votre objet où vous le désirez. Et continuez comme ça à remplir votre scène de tipotes avec Merge en plaçant où vous le désirez. Quitte à aller chercher ma tipote ici auparavant, Merge, et je place. On peut comme ça faire notre collection facilement okay, d'objets et importer comme ça des tas d'objets directement sans utiliser la fonction Merge. C'est-à-dire sans utiliser cliquer Importer, merge. Me Direz-vous à ce moment-là, quelle est la différence Ici, c'est automatique. Les objets portent les mêmes noms. En effet, pour rappel, si j'appuie sur la touche H, je vois typote 1, typote 1, typote 1, typote 1, typote 1. Okay. Autrement dit, tous les objets portent le même nom. En effet, je ne les avais pas renommés. Si je clique ici, c'est exactement la même chose que la touche H. Je vois le contenu et tous les objets portent le même nom. Par contre, si je viens dans File, Importer, Merge, en fait c'est une fonction d'importation, le, le principe de merger, de, de, de fusionner. Cliquez, je vais choisir ici toujours mon objet T-Pot ou Test. Voilà, par exemple, voici. Et là, il va vous dire attention, voici le contenu de la scène. Et là, on peut choisir, on a un filtre. Donc, la différence entre glisser et déposer, c'est qu'ici, vous allez avoir un menu intermédiaire qui va vous proposer un filtre. Est-ce que vous voulez fusionner les géométries, c'est-à-dire les objets 3D, les 2D, les lumières, les caméras, les assistants ou autres que nous n'avons pas encore vus Pour l'instant, je vais prendre t 01. Elle porte exactement le même nom. Lorsque vous utilisez le menu ici de fusion, merge, il va vous dire attention, c'est pas possible, ça porte le même nom. Si je le mets, je risque de détruire. Je détruis l'ancien, je passe au-dessus ou j'auto-rename. Si on fait auto-rename, le voici, modifié, et il s'appelle tipot 02 Par contre, il se positionne au même endroit. On n'a pas la possibilité de le replacer. Voilà donc des techniques qui vous permettent de fusionner directement une scène avec différents éléments. Très 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 rapidement. On vient de voir avec quelle facilité il est avec 3D Studio Max euh, facile d'importer, euh, je veux dire des, des scènes d'extension 3D Studio Max. Qu'en est-il pour d'autres types d'extensions On ne va pas ici voir toutes les extensions possibles de fichiers 3D parce que ça va dépendre du logiciel dans lequel vous travaillez Madbox, ZBrush, Maya, euh, Softimage et autres. Chaque logiciel a son type d'extension. Je vais utiliser l'extension la plus commune pour passer de logiciel en lo logiciel, ce qu'on appelle l'obj. Alors on va observer un petit peu. Voici un fichier en OBJ, je glisse, je dépose. Et là, automatiquement, il me propose de le positionner. Je n'ai pas là de principe de open ou autre, c'est d'office une importation dans la scène. Mon fichier OBJ est directement importé. Par contre, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a eu auparavant... Euh, voilà. Un petit menu, alors quand il y a des conflits de noms, ben il va vous proposer de changer ça. Donc je vais changer le nom. Donc ici, box 1, je vais simplement l'appeler A, valider avec OK. Celui-ci, je vais l'appeler B, OK. Et bien sûr, c'est on va continuer comme ça. La lettre d'Alpha je peux repositionner. On vient de voir que quand il y a un conflit de noms, là, à ce moment-là, vous avez un menu qui vous permet de renommer. Mais néanmoins, il y avait des petites lignes avant et c'est tout euh, le processus d'importation. Alors, comment fonctionne ce processus d'importation Les OBJ, il suffit simplement de glisser, et déposer et vous avez directement vos objets qui viennent euh, s'inclure dans votre scène 3D Studio Max. File, reset. Je ne sauvegarde pas. Je vais faire autre chose maintenant. File, importer. Et je vais dans Import. Import, c'est pour aller chercher des fichiers qui ne sont pas d'extension 3D Studio Max. Si vous cliquez sur All Formats, vous allez voir tous les formats compatibles. Vous avez ici différents types d'extensions. Remarquez que vous pouvez prendre même des fichiers Illustrator, c'est-à-dire en 2D. Ainsi, par la suite, on pourra leur donner une extrusion, c'est-à-dire une distance 3D et une épaisseur. Moi, je vais utiliser l'OBJ et on a comme ça différentes choses. Soit, je vais aller chercher l'OBJ. Sur mon bureau. Ouvrir. Et lorsque vous prenez le menu euh, d'importation OBJ, vous retrouvez les objets qui sont dedans. Il y avait trois objets, le nombre de faces et le preset. Le preset, c'est-à-dire la compatibilité, orientation des axes ou autres du logiciel d'origine. On a comme ça différents types de logiciels d'origine. On ne peut pas dire que Max n'est pas compatible avec les autres. J'importe et on retrouve exactement la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire le menu. Euh, qui fusionne la scène, comme ça, et qui convertit pour 3D Studio Max. Maintenant, si vous voulez exporter pour un autre logiciel, exemple, je vais faire ma teapot, voilà, File, Export. Et là, vous choisissez le mode et l'extension. OBJ, vous retrouvez toujours dans le répertoire de l'utilisateur, je vais mettre ça sur le bureau, je vais l'appeler « Test » enregistré. Et là vous voyez qu'on peut tout à fait travailler et flipper les axes, c'est-à-dire inverser les axes. En effet 3D Studio Max a la fâcheuse habitude de mettre le Z vers le haut, alors que les trois quarts des autres logiciels, le Z est dans la profondeur de la vue. On a des presets par rapport au logiciel qu'on veut désirer, hein, qu que vous désirez pardon, d'exporter. De, Je vais laisser en mode box, export, et on retrouve exactement le même principe l'importation c'est à dire un petit menu qui vous montre le processus d'exportation très bien et là bah, vous pouvez tout à fait venir le mettre et vous retrouvez votre petit pote qui revient en 3D Studio Max vous voyez que c'est facile en tout cas de pouvoir exporter et importer on verra par la suite remplace euh, surtout pour l'animation ou pour euh, alléger certaines choses donc ça ce sont des notions qu'on verra tout de suite par la suite exporter on peut exporter tout ou exporter uniquement l'objet sélectionné ou exporter dans un format bien défini de 3D Studio Max vers un autre euh, principe d'Autodesk, le DWF. La fonction remplace. Alors la fonction remplace est généralement utilisée pour l'animation, mais pourquoi pas. Alors regardez un peu ce que je vais faire. Je vais tout simplement euh, animer une boîte. Donc là, on se souvient, nous avons déjà fait une boîte. Okay. Voilà la taille de la boîte. Je vais demander que cette boîte ait par exemple une taille, encore une fois, de 50. Tab, 50, tab, 50. Voilà, j'ai mon cube. Alors, euh, ben voilà mon cube de 50 cm sur 50 cm. Et mon cube, je vais le renommer. Je vais donc dans Modifier et je change son nom ici. Je vais l'appeler Fly. F -L -Y. Bien, je vais avancer ici, cliquer sur AutoKey. Et animé tout simplement. Pour animer en déplacement, W et j'anime. Voilà, mon objet est tout simplement animé. Je peux revenir ici au-dessus et monter, et j'ai cette petite animation. Bon, rien de terrible, mais pourquoi pas. Je désactive AutoKey et je vais sauver cette scène. Save as sur mon bureau pour avoir plus de facilité à le trouver directement. En tout cas, pour cet exercice ici, je vais appeler ça Vol et j'enregistre. Très bien. Je reset complètement toute ma scène. Je vais créer une tipote et cette tipote euh, devrait avoir plus ou moins les mêmes proportions. En tout cas, ça va m'aider. Cette tipote, c'est assez amusant. Je vais l'appeler tout simplement. Le même nom, très important, F L Y. Je valide. Donc la tipote porte le même nom. Et je sauve la scène. Ici, je vais sauver la scène en appelant simplement objet. Si je fais file, je retrouve ici mon travail d'aujourd'hui, objet et vol. Je peux demander de le voir plus grand. Je retrouve bien ma tipote et la boîte. Donc, je suis allé dans Open et je retrouve comme ça euh, la, comment je dis, la liste des objets. Donc, je vais reprendre, excusez-moi, Open, Vol. Voilà la boîte. La boîte porte exactement le même nom que la tipote et la tipote porte le même nom de la boîte, Fly. Je vais maintenant... Importer en mode remplace et je vais chercher le fichier 3D Studio Max contenant l'objet qui porte le même nom. Il vous dit ⁇ Écoute, tu n'as qu'un objet qui est compatible, fly ⁇ Ok, tu es sûr de remplacer et aussi les matériaux, nous verrons par la suite. Oui. Et bien maintenant, la tipote remplace la boîte parce qu'elle porte le même nom et récupère l'animation. Alors ça, c'est pas mal du tout, parce que ça vous permet tout simplement de travailler, par exemple, un avion avec des hélices qui tournent, des tas de petites choses, etc. Et que vous pouvez travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre. Votre partenaire, quant à lui, anime simplement une boîte qui a les mêmes volumes, et il l'anime dans un décor. Il suffit par la suite de remplacer. La condition, c'est que l'objet porte le même nom. À ce moment-là, vous chargez la scène qui contient la boîte et vous remplacez avec l'objet plus évolué. Voilà la fonction remplace, généralement très utile pour l'animation. Bien, il y a d'autres choses encore, mais ça nous allons voir quand nous allons commencer à travailler notre exercice de modélisation et de scène. En effet, vous pouvez avoir managé votre scène, c'est-à-dire sauver directement dans un seul répertoire euh, vos textures, euh, vos images ou autres. Alors justement, en parlant de textures et d'images, on va voir maintenant deux, trois petites choses euh, intéressantes. Regardez, tipote, voilà, je fais ma tailleur. je redis 3D Studio Max et je vais dans un, un dossier, un répertoire dans lequel j'ai mis deux, trois petites images. Ok, je vais euh, tout simplement les mettre ici sur le côté et je vais glisser, déposer sur l'objet. Voilà, l'objet a maintenant l'image. Ben oui, tout à fait. J'ai simplement glissé et déposé sur l'objet. Si vous glissez et vous déposez à l'arrière, il va vous demander si vous voulez le voir en viewport et en environnement. Le viewport, ça signifie qu'il sera visible dans la vue viewport. Environnement, c'est qu'il sera visible aussi au rendu. Si je valide, voilà ce que j'obtiens. Je l'ai dans la vue, en background, et je l'aurai au rendu. Le rendu, Shift-Q, majuscule-Q. Vous voyez comme quoi c'est relativement simple et hyper rapide. Donc c'est même tellement rapide que je me demande bien si je ne vais pas recommencer à vous le remontrer. Donc File, Reset. On crée un objet. Alors justement, je vais en profiter, je vais aller chercher les objets euh, qui sont faits, comme par exemple mon buste de tout à l'heure. Voilà, glisser, déposer, open. Alors j'avais un menu en me disant que mes unités n'étaient pas les mêmes, donc bien sûr vous validez. Je vais rechercher mes images. Glisser, déposer. Le buste est constitué de plusieurs éléments. Voici. Ok. Voilà mon buste maintenant qui obtient les textures. Vous voyez que cette version est comme ça, hyper rapide. Et en background. Viewport background, c'est-à-dire dans la vue et dans l'environnement, c'est-à-dire lors du rendu. Voici maintenant Shift Q, le rendu qui est fait. Alors, ce n'est pas forcément la bonne technique, mais ça nous permet de les déposer rapidement pour pouvoir par la suite les gérer ou autre. Pour un, un principe rapide, pour éventuellement faire des choses très simples rapidement, c'est vraiment très efficace. Nouveau. Nouveau, quoi de neuf donc Eh bien, nous allons voir. Je vais faire une tipot, file, new, new all, keep object, keep object, à hiérarchie. Dans new, on a euh, trois options. New all, je ne sauvegarde pas, tout semble nouveau. En fait, la différence avec reset, c'est ceci. Tipot, new, non, voilà, et vous pourrez marquer. Que l'environnement n'est pas reseté, c'est-à-dire n'est pas réinitialisé. Alors que si je fais un reset, tout est réinitialisé. La différence est autre. Si je crée par exemple une tipote, une autre, une autre, je vais faire une hiérarchie. Pour rappel, enfant, parent, regardez bien quand l'icône change, je clique, je maintiens la pression et l'icône change. Move, OK. Je vais agrandir et je vais animer tout simplement. Je vais venir me mettre sur le frame 50, auto-key et je bouge. Voilà, forcément tout le monde suit. On peut faire un peu de manque de discipline en bougeant simplement les enfants. Voilà. Et on a comme ça un mouvement de ce type, très bien. Je vais sauvegarder edit alt, c'est une sauvegarde temporaire. Bien. Maintenant, new, si je fais new all, forcément, il n'y a pas de souci, les objets disparaissent, mais mon environnement reste identique. Edit, fetch pour récupérer. File, new, keep object. C'est-à-dire qu'ici, tout va être nouveau, mais je garde les objets. L'animation disparaît, et les hiérarchies ne sont plus de ce monde. C'est-à-dire que les notions et les liens enfant-parent disparaissent. Edit, Fetch. Donc j'ai récupéré ma scène. New. Garder les objets et la hiérarchie. Dans ce cas, l'animation disparaît, mais la hiérarchie existe toujours. Il y a d'autres techniques. Voici une astuce. Fetch. L'autre technique est propre à les raccourcis clavier relatifs à l'animation. Ici, je récupérais mon animation. Si vous voulez supprimer l'animation de celui-ci, celui-ci, celui-ci ou d'un groupe sélectionné, ce n'est pas très compliqué. Je sélectionne l'objet Alt, bouton de droite. Alt, bouton de droite, Delete, Select Animation. Et bien sûr, ça marche pour une sélection multiple. Alt, bouton de droite, Delete, Select Animation. On va personnaliser maintenant une scène, ou en tout cas donner des informations pour quelqu'un d'autre ou pour appeler vous-même. Je vais charger mon fichier buste, voici. Propriété, file, propriété. Je vais lui donner un nom buste pour formation. Oups. Voici. L'auteur, ben c'est moi, J-A la compagnie, un peu de publicité, que diable, www.cgitrainer.com Commentaire, par exemple, scène à texturer et éclairer. Je valide avec OK et je sauve, bien sûr, cette scène. Save. Voilà. Je fais un petit « Reset ». Je recharge la scène pour bien vérifier si tout est là. Propriété, File, Propriété. Et je retrouve comme ça Bus pour formation, Jean-Yves, CGI Trainer, salle à texturer et éclairer. Ce qui est déjà très bien quand vous envoyez par exemple du télétravail ou ce genre de choses. Vous pouvez dire bah, écoute, toutes les infos sont là, c'est attaché à la scène ou autre. Pour vos petits droits d'auteur aussi, c'est éventuellement pas mal quand les personnes ne connaissent pas cette petite astuce. Alors, les nouveautés dans le 3D Studio Max pour faciliter la sauvegarde, le chargement et tout. Le fait de glisser-déposer, c'est pas mal, mais vous retrouverez ici au-dessus exactement les mêmes choses. New Scene, c'est l'équivalent de New Scene que nous avons auparavant. Open File, avec la possibilité de choisir du Max ou éventuellement d'autres logiciels d'AutoDesk comme Viz okay, ou du Caractère. Très bien. Sauver. Toujours avec le même principe, sauver max ou des fichiers caractères. Annulation, restauration. Et par contre, un nouveau venu très intéressant, faire votre nouveau projet. Ici, nous voyons euh, tout simplement que le projet, c'est sur le disque dur C, user, JA, c'est moi, enchanté, euh, le bureau, etc. Donc là, ici, j'avais fait un nouveau projet. Alors, comment ça fonctionne ben, Pour rappel, Lorsque vous allez dans Windows, User, vous retrouvez votre projet avec les scènes, etc., etc. Et vous savez que lorsque je fais par exemple une sauvegarde ou autre, tout se met dans les auto-backups de l'utilisateur. Si vous créez ici un nouveau projet, vous pouvez choisir votre nouveau projet. Dans mon cas, je vais mettre sur le bureau, créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple Formation Test. Et je valide. Que se passe-t-il Eh bien, regardez, je vais réduire et je retrouve mon dossier formation test. Qu'y a-t-il dans mon dossier formation test Archive, AutoBack, etc. C'est-à-dire etc. que je retrouve exactement la même chose qu'il y avait au départ dans l'utilisateur JA Document 3D Studio Max. Vous pouvez comme cela personnaliser directement le chemin de 3D Studio Max avec tous vos projets à l'intérieur, vos propres tobacks, vos propres rendus, votre propre scène, etc., etc., Ce qui facilite quand même pas mal, ok, votre travail. Il y a pour ça un fichier de configuration, pass configure file. Voilà, ce qui va vous faciliter comme ça la personnalisation de votre travail. Nous allons voir maintenant une petite gestion de base de nos projets. Pour rappel, si je viens ici, je retrouve que mon projet se trouve dans User Jean-Yves Arbois Document 3D Studio Max. En effet, si je viens dans le navigateur de Windows, je vais retrouver tout simplement ici Ordinateur Utilisateur Jean-Yves Arbois 3D Studio Max. Donc, on est donc bien d'accord que tout ça se retrouve tout simplement sur le disque dur C, utilisateur, Jean-Yves Arbois, document, 3D Studio Max. Et je retrouve comme ça, archive, etc., etc. Si je viens maintenant dans 3D Studio Max, que je viens ici pour créer un nouveau. Je me mets sur le bureau et je vais créer un nouveau dossier. Automatiquement, je vois le dossier en train de se créer. Je vais donner un nom, comme par exemple formation. OK. Et je valide. Qu'est-ce que je retrouve ben Dans ce nouveau dossier, je retrouve exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que je retrouve Archive, Autobac, Download, comme le, le fichier d'origine. C'est exactement la même chose. Avec un petit fichier à la racine très intéressant qui est la configuration du chemin. Si je reviens dans 3D Studio Max, je vois maintenant que mon nouveau projet se trouve sur mon bureau et s'appelle Formation. Si je vais chercher l'ancien, je glisse et je dépose tout simplement dans l'environnement de 3D Studio Max. Il m'est possible de le remplacer avec Load ou de le fusionner. Merge permet comme ça de fusionner, comme un fichier. Alors on me dirait la fusion pourrait me servir à quoi eh bien, Comme ça je garde mes propres fichiers, mais je peux importer les fichiers d'un autre candidat ou sur un projet qui est en ligne ou autre. Si je fais Load, je retourne ici et je retrouve. En fait, mon fichier d'origine, c'est user documents et je ne suis plus sur mon bureau, je ne suis plus dans le répertoire formation. Bien. Cette gestion peut se faire aussi dans la partie customize. Customize, configure user path. À ce moment-là, on voit la configuration du chemin, on peut personnaliser différentes choses, modifier ou en faire dans l'absolu ce qu'on a besoin. On peut sauver, on sauve donc le fichier qu'on vient de voir, le loader ou le merger. C'est exactement la même chose. Si vous faites, vous cliquez ici, vous retrouvez le menu rapide qu'on a retrouvé ici au-dessus. Voilà, maintenant vous pouvez personnaliser okay, votre projet et fusionner comme ça avec d'autres projets de quelqu'un d'autre. Voyons maintenant la gestion des layers ou des groupes ou ce genre de choses. En fait, lorsque vous avez fait un projet, euh, il est des fois très intéressant de bien comprendre le concept. Alors ça va me permettre aussi, ben, tout doucement, de, euh, de se rendre compte qu'on a déjà vu pas mal de choses. Donc je vais créer euh, une simple tipote avec une autre, une autre, et voici. J'ai comme ça trois objets. Je vais les sélectionner. CTRL A. Et je vais ici, dans cette zone, rentrer un nom. Exemple. Oups, avec un T bien sûr. Voilà. Et je valide en appuyant sur Enter, c'est très important. Je crée maintenant une boîte du bas vers le haut, je clique du bas vers le haut. Je sélectionne ces deux boîtes. Pour sélectionner une multi-sélection, j'appuie sur Q, il n'y a pas de souci, vérifiez bien le mode de sélection que vous avez ici en appuyant sur Q, ça va varier donc faites très attention à ça et j'appuie sur contrôle. J'ai sélectionné comme ça deux objets. En effet, contrôle permet de sélectionner deux objets. Je donne un nom et je valide. Bien. Maintenant, si j'appuie sur H au clavier, je vais retrouver tout simplement mes objets. Mais je vais retrouver aussi le nom sélection 7. Toutes mes boîtes ou toutes mes tipotes. Si je fais OK, automatiquement les tipotes sont sélectionnées. Remarquez, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur H en effet, vous pouvez revenir ici, sélectionner les boîtes, sélectionner les tipotes. Sélectionner les boîtes, sélectionner les tipotes. Si vous voulez rajouter un objet, par exemple, à un groupe, à ce moment-là, vous cliquez ici, Édition de la sélection. Vous retrouvez comme ça la gestion des tipotes très simple, que vous pouvez supprimer ou autre. La gestion des boîtes. OK. Vous cliquez sur le mot tipote, et alors là, avec le curseur de droite, vous pouvez renommer, couper, copier, etc. Plus intéressant, Addition Select Object. Quel objet est sélectionné Cette nouvelle grande tipote. Addition Select Object. Automatiquement, elle va se retrouver dans le groupe tipote j'en veux pour preuve que si maintenant je choisis tipote, elles sont toutes sélectionnées. Voici. Donc ici permet d'avoir, on pourrait dire une sorte de layer ou de groupe nommé. D'ailleurs, si je reviens dans edit, nous allons voir undo, hold, fetch, delete, clone. Bon, on descend on descend on descend on descend on descend. Manage, sélection set. C'est exactement pareil. Alors, euh, pourquoi je viens de citer tout ce qui est dans Edit Parce que l'air de rien, on a déjà vu pas mal de choses. En effet, Undo, bah vous connaissez, c'est l'annulation du déplacement, le fameux Ctrl Z tout simplement. Ou bien ici, avec son historique. Bien. Redo, bah c'est l'inversion, c'est restaurer annulation. « Hold »,« Fetch »,« Sauvegarde rapide »,« Fetch »,« Restaurer ».« Détruire euh, »,« Détruire au clavier », pareil. « Clone », ça permet tout simplement de directement cloner un objet, en copie, en instance ou en référence. Nous n'avons pas encore vu la référence. C'est exactement la même chose que si vous appuyez sur « Shift » et que vous choisissez un des axes de transformation. Ou bien, si vous ne voulez pas déplacer, « Curseur de droite », Clone. Et là vous pouvez faire une copie et vous retrouvez une copie positionnée exactement au même endroit. Bien. Move, rotation, échelle. Avec les raccourcis clavier, sauf pour celui d'échelle, ils ont oublié de le mettre. Transformation type IN. F12 au clavier, c'est exactement la même chose que le curseur de droite sur les icônes de transformation, position, rotation, échelle, je fais le curseur de droite, ou bien curseur de droite et venir sur ces petits onglets en face, okay, et on retrouve comme ça les transformations type in. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer au clavier les valeurs de transformation. Transformation Toolbox, nous l'avons déjà vu aussi. Qui permet de faire des rotations, des changements d'échelle, aligner le pivot ou centrer rapidement l'objet, voire le dupliquer. Comme quoi on se rend compte qu'on a quand même pas mal de redondance dans le terme d'outils. Sélection All, sélection rien, sélection inversée. Voici les raccourcis clavier que je vous disais auparavant. CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-D pour ne rien sélectionner et CTRL-I pour inverser la sélection. Exemple, CTRL-I, j'inverse la sélection. CTRL-A, je sélectionne tout. Et CTRL D, ben je ne sélectionne strictement rien. Bon, ceci dit, rien n'est merveilleux, tout est marqué ici. Si je sélectionne un objet, je peux sélectionner le similaire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les typodes seront sélectionnées. Là, c'est par rapport à la topologie. En effet, si je crée maintenant un objet, curseur de droite, je retrouve ici Select Similaire. Toutes mes typodes sont sélectionnées. Inutile donc d'aller dans typote ici, là c'est par rapport à un groupe nommé, on pourrait dire, quoique c'est une sélection qui porte le même nom. Mes objets ne sont pas groupés, ils sont toujours indépendants. C'est totalement différent, nous allons voir cette notion par la suite. Curseur de droite, select similaire. Eh bien, attention, si je prends cette tipote et que je convertis en poly, curseur de droite, select similaire, Oh oh, en effet, ceci ci sont les objets primitifs, ceci devient un poly. Même si la forme devient semblable, ce n'est plus similaire du tout. Donc c'est bien tributaire du type d'objet et de mode de géométrie. Nous avons vu qu'il y avait quatre sortes de modes de géométrie. Select instance, là lorsque les objets sont instantisés, il va permettre de sélectionner les instances. Qu'est-ce que les instances ben, Les instances, c'est ceci tipot. J'ai fait Move, Shift pour déplacer. Je vais en faire 3 en instance. Les instances, lorsque je vais dans Modifier, les objets sont instantisés. Leur modification suivent. Leur modification structurelle, pas le fait de déplacer ou autre. Pour cela, il est plus intéressant de faire Enfant parent. Bien sûr, dans ce cas-là, si je fais Curseur de droite, Select Similaire, toutes les typodes sont sélectionnées. Par contre, si je vais dans Edit, Select Instance, uniquement les instances sont sélectionnées. Autrement dit, tous ceux qui sont instantisés, qui ont un lien. Pour rappel, vous pouvez prendre un objet et le rendre unique. Dans Modifier, vous avez ici Rendre unique. À ce moment-là, il n'est plus instantisé, il ne dépend plus des autres. Autrement dit, si je fais ici Select Instance, il n'est pas activable. Select similaire, toutes les types sont sélectionnés. Si je prends un objet ayant une instance, select instance, les instances sont sélectionnées. Select by, name, layer ou couleur. Layer, on n'a pas encore vu. Couleur, on peut choisir par couleur, oui, pourquoi pas? Disons que très peu de gens utilisent ce genre de choses. Donc tous les objets seront sélectionnés par la même couleur. On verra par la suite comment on peut créer avec les mêmes ou des différents types de couleurs. Je pense que Select by Name, la touche H au clavier, est plus intéressante car on retrouve aussi les noms. Ok, de sélection groupée. Select région, on retrouve ici toutes les régions rectangles, circulaires, etc. Avec rencontrées ou non rencontrer. C'est exactement la même chose que... Ceci, mode de sélection, rencontré ou non. Alors, manage name set, eh bien on vient de le voir, c'est l'icône qui était ici à côté. Et puis vous avez object-propriété. Nous avons légèrement vu ça avec simplement le display. Display a box. C'est simplement un curseur de droite, object-propriété. La différence, c'est que si je sélectionne plusieurs objets, Object Propriété est accessible ici. Évidemment, si vous ne sélectionnez rien, Object Propriété n'est pas accessible. On peut comme ça tout sélectionner et dire que tous mes objets, Object Propriété, soient vus en termes de boîte. Et tous mes objets sont optimisés et sont vus en termes de boîte. CTRL A, Object Properties, Display as Box, j'enlève. Donc Display Propriété, c'est la manière dont c'est affiché. Voilà, nous allons voir en fait le menu Edit et les redondances que l'on retrouve dans 3D Studio Max. Peut-on sélectionner rapidement des objets avec une couleur Peut-on considérer que c'est une sorte de layer ou de groupe Oui, c'est-à-dire que les layers peuvent être pas forcément nommés, mais peuvent être symbolisés par une sorte de couleur. Lorsque vous créez ici des couleurs, par défaut, Assign Random Color est actif. Qu'est-ce que cela signifie J'ai simplement cliqué sur Couleur. Mais c'est qu'à chaque création, les couleurs varient. Inutile de vous dire que dans des conditions comme ça, pour obtenir deux fois les mêmes couleurs, c'est un peu, voire même très aléatoire. Autrement dit, lorsque vous venez dans Edit, Select by Color, que vous cliquez un objet, bah vous avez peu de chances de sélectionner vraiment les deux objets qui vous intéressent. C'est en fonction de la variation de couleur qui est aléatoire. Je vais annuler donc cette scène. Je vais faire autre chose. En même temps, c'est notre première approche. Regardez bien, je vais cliquer ici sur la couleur. Je vais désactiver Assign Random Color. Je vais choisir une couleur qui va bien se voir ici dans ma vue. OK. Je crée une boîte de la grille vers le bas. Son point pivot est donc ici. Auto-grid. Je crée maintenant une boîte vers le haut. Et je regarde dans cette vue-ci, en même temps à côté et de l'autre côté. Donc dans toutes les vues, je regarde la hauteur que je détermine. Alors pourquoi faire ça ben Tout simplement parce que ça me permet, tout en étant en auto grid de choisir comme ça, la boîte sur laquelle je vais créer. Ici, je crée à cet endroit et je soulève. Et je regarde dans la vue dessus, ici, ok, donc la vue frontale, au-dessus, pardon. Et je regarde jusqu'où je vais. Ce qui me permet par exemple de tourner rapidement de cliquer sur cette boîte et toujours en regardant dans les autres vues de regarder l'exclusion que je lui donne très bien pour désélectionner tout curseur de droite dans le vide là je ne suis plus en mode création et je clique à l'extérieur curseur de droite pour quitter le mode création et je clique simplement à l'extérieur avec le bouton de gauche maintenant je choisis une autre couleur assigne random et désactiver. J'ai simplement cliqué sur le carré ici de couleur. Je prends Tipote, je suis toujours en auto-grid. Autrement dit, il n'y a pas de souci pour placer les Tipote directement sur cette boîte. Très bien. Curseur de droite pour arrêter le mode création. Et curseur de gauche pour ne rien sélectionner. Je vais enlever la grille pour y avoir une meilleure lisibilité. Sans plus, G au clavier. Maintenant, Edit, Select by Color. Je clique sur les boîtes. Tout le décor est sélectionné. Tout simplement. Edit, Select by Color. Je clique sur les tipotes. Tout est sélectionné. On peut comme ça cumuler. Les typodes sont donc sélectionnés. Donner un nom. Edit, Select by Color, Boîte, je donne un nom, Décor. Toujours valider le nom avec Enter. Bilan maintenant, j'ai cumulé les modes de sélection ou de layer que je peux retrouver ici. Voilà une des manières aussi de créer. On peut considérer des groupes sélectionnés ou des layers. Alors les layers ou les regroupements par couleur, bon c'est une chose, mais ce n'est pas tout à fait les vrais layers dans, dans ce que conçoit 3D Studio Max. Les layers sont en fait ici, dans Manage Layer. Alors, comment fonctionnent les layers Alors quand vous allez faire une scène, vous allez voir que des fois certains objets, vous ne voulez pas les voir ou les gérer autrement. Alors, nous allons voir justement une nouvelle notion de cacher, de geler, de voir au rendu ou de gérer la couleur. En effet, pour rappel, les couleurs ici, j'ai désactivé le principe de random. Autrement dit, les couleurs seront toujours identiques. Bien. Par défaut, le layer contenant tout max s'appelle 0. Bah, C'est le layer par défaut, tout simplement. Si je crée des tipots, automatiquement, ces objets se retrouvent dans le layer. Je peux sélectionner toute cette hypote en faisant CTRL A tout simplement et je crée un nouveau layer. Le layer par défaut, qui était la scène d'origine de 3D Studio Max, ne contient maintenant plus rien. Attention, si ce layer est actif, lorsque vous allez créer un nouvel objet, il va se retrouver dans le layer actif. J'aurais dû par défaut activer je veux dire, le layer 0. Bon, c'est pas grave, vous pouvez sélectionner votre objet, 4, revenir au-dessus. Past. Directement, il se retrouvera dans le layer par défaut. Je peux créer comme ça plusieurs boîtes qui se retrouvent dans le layer ici. Je peux faire une multi-sélection, cut, par défaut, paste, cut, paste. Bien, je peux sélectionner une multi-sélection avec contrôle les trois objets boîtes et les remettre dans un nouveau layer. Alors layer 2, layer 1, layer défaut, bon défaut on peut comprendre, mais je veux dire que c'est assez laborieux d'avoir toujours les mêmes noms. Vous pouvez sélectionner votre layer, curseur de droite, rename. OK. Tipots, rename. Box. Très bien. Alors maintenant, que se passe-t-il Vous avez des choses assez intéressantes. Il vous montre ce qui est sélectionné. Je peux cacher. Geler. Alors vous me dites gelé, qu'est-ce que c'est Ben geler, ça vous permet de ne plus pouvoir les sélectionner. Et ce qui est pas mal lorsque vous voulez travailler simplement, excusez-moi, simplement des objets. OK Ou vous voulez ne pas sélectionner les autres. Ne pas voir au rendu. Alors ne pas voir au rendu, lorsque je vais faire un rendu, Shift Q. On peut ne pas voir les objets. Vous direz, mais pourquoi sont-ils visibles Vous allez voir ici une barre, ok, pour le layer. Par contre, certaines propriétés comme le rendu ne s'appliquent pas aux objets. Alors ça, c'est assez particulier, mais bon, c'est une des particularités que nous allons voir par la suite. Ce qui s'applique directement aux objets sans souci, c'est caché, gelé. Ne pas être pris en compte dans la radiosité sont des petites choses que nous verrons par la suite, surtout dans le DVD Lumière et matière. Revenons un petit peu à cette gestion. Pour les layers, bon, somme toute, ce n'est pas compliqué. Apparemment, ils permettent surtout de cacher ou de geler. Certaines autres options se font par objet. Ça, c'est le principe base de layer. Alors, se font par objet, qu'est-ce que cela signifie Je vais réduire cette fenêtre et je vais agrandir celle-ci pour une meilleure compréhension. Regardez bien, les trois tipotes sont sélectionnés. Je travaillerai donc par rapport aux tipotes. Curseur de droite, Object Properties. Ici, je suis dans les propriétés de l'objet. Je retrouve exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que je retrouve, euh, par exemple, Renderable. Et regardez, Render Control. Rendering Control, c'est exactement ceci. Si je fais Non Renderable, je valide elles seront non Renderables. Et regardez, maintenant, vous avez toute une barre le layer lui est visible mais les objets ne se rendent pas. Alors on dit c'est un peu bizarre. En fait, les processus de rendu et autres sont gérés soit individuellement par objet ou par layer. Si vous voulez que tout ceci soit géré par layer, regardez, je sélectionne les objets et je demande que la gestion render control se fasse par layer. Observez le changement par objet, par layer, par objet, par layer. Et on peut gérer comme ça, par layer, différentes choses. Display, propriété, par object ou par layer. Ici, les tipotes, je vais demander que le Rendering Control se fasse par layer. Je valide. A partir de là, si je cache, c'est la gestion du layer qui prend le dessus. Le rendu, c'est Shift Q. Sélection, non, maintenant les boîtes. Curseur de droite, Object Properties. Je vais demander que la gestion Display se fasse par layer. Le rendu, je n'y bouge pas. Très bien. Si je reviens sur les boîtes, j'ai une gestion Layer Propriété ou Object Propriété. Curseur de droite sur le mot du layer Boîte, Layer Propriété. Et je peux demander que tout ça soit vu en termes de boîte. Et regardez, tous les layers... Display propriété est vu en mode de boîte. Autrement dit, je peux gérer comme ça le display, c'est-à-dire l'optimisation de l'affichage, ou le rendu. Ici, le render control, ça ne sert à rien, vu que mes objets boîte ont comme propriété une gestion uniquement du display par layer, mais le rendu est individuel. Ça vous permet comme ça des cocktails assez intéressants. Nous allons voir par appel tout simplement ok ce que c'est que de hide -er » ou de friser c'est à dire de cacher ou de geler là nous allons voir aussi à l'utilisation par la suite sur le dvd layer couleur et autres en effet alors ben voilà en fait comment ça se passe j'ai ici les box les tippots. je suis toujours dans la gestion des layers si je prends par exemple les boîtes toutes les boîtes une avec CTRL 2 et 3, donc les trois boîtes ici. Je clique sur la couleur, je peux modifier la couleur sans aucun problème. Voilà, les boîtes viennent de changer de couleur. Bien, on peut sélectionner ce qui est sur surlumineux, ce qu'ils appellent Highlights. Je peux tout simplement sélectionner tous les layers. Donc ici, je vais euh, sélectionner tous les layers. Voilà. Et je vais. Caché, affiché, gelé, oui ou non. Donc, ici, ce sont des sélections rapides, okay, au-dessus. On retrouve généralement le même type de sélection à cet endroit. Select, Highlight Select Object Layer, donc forcément, montrer tout ce qui est sélectionné. Okay, highlight All Layer, gelé, caché, etc. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Ne pas oublier surtout la gestion. Okay, par object ou par layer que l'on retrouve dans une multi-sélection. Object properties, par layer ou par objet. Soit pour le principe du rendu, on verra tout ça en détail, ne vous en faites pas, ou dans le principe de l'affichage. Les groupes, à ne pas confondre avec les layers ou les sélections. Les groupes, c'est vraiment pour grouper les objets. Les groupes sont assez intéressants dans 3D Studio Max. Exemple, je vais créer une boîte. Autograde, une autre boîte au-dessus et encore une autre boîte. Vous avez remarqué que j'ai désactivé le random color. Si je sélectionne tout, CTRL A, je vais simplement sur groupe, groupe. Je donne un nom, bah, tout simplement, groupement par exemple. Très bien. Lorsque j'appuie sur H, je retrouve groupement. Tout simplement. Mon groupe va réagir comme un objet. Il a son propre espace objet. Et si je bouge, je bouge tout le groupe. Si vous voulez bouger les composants de ce groupe, c'est-à-dire une des trois boîtes, vous retournez sur groupe et vous faites Open. À ce moment-là, vous pouvez bouger le groupe et vous remarquez un rectangle jaune, une quadrature jaune qui va s'adapter automatiquement. Lorsque vous appuyez sur H, vous retrouvez le groupe et ses composants. Tout simplement. Là, je peux sélectionner le groupe ou venir choisir ce que je veux dedans. Ce qui est très aisé parce que ça me permet de travailler directement le groupe et d'animer éventuellement des éléments à l'intérieur. En effet, si je m'amuse à faire AutoKey ou j'anime par exemple un élément à l'intérieur, Voici, je prends le groupe et pendant le temps que cet élément bouge, je peux animer le groupe. Autrement dit, j'obtiens comme ça ce genre de choses très rapidement. Vous donc le groupe est assez intéressant. Groupe, close, si vous faites close, vous n'accédez plus à ces composants, mais néanmoins tout est resté, bien sûr, l'animation, il n'y a pas de souci. Ce qui vous évite éventuellement de sélectionner des éléments qu'il ne faut pas à l'intérieur. Évidemment, si vous appuyez sur H pour voir le contenu, vous ne retrouvez que votre groupe. Dans groupe, vous avez la manière aussi autre d'exploser le groupe. À ce moment-là, la notion du groupe n'existe plus et vous perdez complètement l'animation de ce groupe. OK. Et bien sûr, CTRL-Z vous permet de récupérer okay, l'étape précédente groupe, c'est pour dégrouper. C'est plus ou moins l'équivalent d'Explose. Okay. Voilà. Voilà pour ce qui est des gestions de groupe. Assembly est plus pour les lumières. On verra ça éventuellement par la suite. Donc groupe, add group, open, close, attache, des tâches, c'est pour venir rajouter des choses. En effet, ici je vais recréer une nouvelle scène. Avec une, deux, trois tipotes et une boîte. Je sélectionne ces trois théières et je vais grouper tout simplement. Je laisse le nom par défaut. Dans ce groupe, j'ai oublié la boîte. Ce n'est pas grave. Vous pourrez regarder que je fais Attache. Voilà. J'ai cliqué l'objet. Je suis allé dans le groupe Attache et j'ai été sélectionné le groupe. Automatiquement, il fait partie du groupe. Je répète, CTRL Z. Je sélectionne la boîte, non pas le groupe mais la boîte, groupe attache, et je clique sur le groupe. Automatiquement il est attaché au groupe. Ouais, donc les groupes c'est quelque chose d'autre. Hein. Donc ne pas confondre avec les noms euh, d'une sélection qui regroupe en fait des objets, des layers, les groupes sont physiquement, euh, réagissent physiquement euh, comme des objets. Donc ils ont leur propre espace objet. Les notions d'accrochage. Alors l'accrochage, c'est quelque chose qui va vous aider à créer sur un support tel que la grille ou autre. En effet, si je veux créer une boîte, ben voilà. Ben, la boîte est libre. On voit qu'elle se met un peu n'importe où. Se met n'importe où, c'est-à-dire que je la crée d'une manière libre. Libre, c'est-à-dire qu'elle ne s'accroche pas aux composants de la grille. Les composants de la grille sont donc les points, là où les segments sont, se croisent. Ici, dans ce cas-ci, on se rend compte que la boîte est créée dans le libre et n'est pas attachée à la grille. Je vais supprimer cette boîte et je vais ici me mettre en accrochage 3D. Vous avez différents types de D, 2 D demi 3D. Généralement, je reste en 3D. En effet, lorsque vous êtes dans une vue 2D, comme front, top, left ou autre, de toute façon, il sera en 2D. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je reste en 3D tout simplement. Ces raccourcis, c'est S. En effet, S, c'est pour activer l'accrochage. Lorsque vous faites curseur de droite, vous pouvez choisir à quoi vous accrochez. À la grille, au pivot, perpendiculairement, etc. Bien. Je répète, curseur de droite sur l'icône, je vais mettre en gris point. Je valide avec S pour être accroché. Lorsque je fais la boîte, je vois le curseur qui s'accroche avant la création et qui me montre comme ça. L'accrochage. Bien, maintenant les boîtes seront toujours par rapport à la grille. Je peux choisir curseur de droite face, enlever la grille et l'accrochage reste actif. À ce moment-là, je me mets par rapport aux faces. Vous pouvez remarquer que les faces sont triangulaires. Ça nous rappelle le menu de départ. En effet, dans la théorie, je vous expliquais que les objets. Même si vous avez l'impression d'avoir une face rectangulaire, c'est toujours de base des triangles constitués de trois points, trois segments, et chaque géométrie est constituée de différents triangles. À ce moment-là, je crée la boîte par rapport à la face. Attention, les élévations aussi, donc dans ce cas-là, c'est un peu laborieux. Lorsque vous créez une surface, vous pouvez désactiver okay, automatiquement le scale. Alors bon, ce n'est pas franchement facile, donc ce que je peux vous conseiller dans ce cas-là, c'est plutôt l'autogrid. En direz-vous, mais alors à quoi servent les accrochages face ou autre Mais surtout lorsque vous allez modéliser ou créer des combinaisons. Alors, pour les combinaisons, je vous invite à aller voir le chapitre Modeling de base, Combinaisons, murs, fenêtres et portes, et vous allez tout de suite comprendre. Bon, avant d'aller là, n'oubliez pas d'aller voir d'abord la création des murs, des portes et des fenêtres. Mais on va comprendre euh, par la suite ce que je vais vous expliquer. Vous avez une astuce qui est un raccourci clavier. Reset. Alors, le raccourci clavier, c'est quoi C'est ceci. Je crée une boîte. Et le raccourci clavier que j'utilise le plus, c'est Shift, bouton de droite. Là, je choisis. L'accrochage que je désire. Je désactive face, bouton de droite, gris point, S, et donc je ne vais plus jamais sur cette icône. Là, je suis en accrochage boîte, euh, boîte gris, pardon, voilà, très bien. Shift, bouton de droite, je vais en accrochage face, Shift, bouton de droite, j'enlève grid, S est toujours actif, et je peux comme ça, par exemple, créer une tipote sur les faces que je désire. Attention, ce n'est pas de create c'est donc par rapport aux faces que je sélectionne. Shift, bouton de droite, je choisis sur quoi je veux m'accrocher. En même temps, ce menu vous propose aussi Grid and Snap Setting. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est la gestion de la grille, exactement comme les menus que nous avons fait ici avec le curseur de droite, avec différents types d'options. Ces options, nous allons les voir maintenant, au prochain chapitre. C'est-à-dire les options de personnalisation de la grille et bien sûr qui influencent l'accrochage. Nous venons de voir les bases et les notions d'accrochage. Alors, nous allons maintenant, pour voir un peu plus de choses, créer un cylindre. Voici. Je vais basculer en mode rotation. E au clavier. Si je clique sur l'accrochage rotation, je me rends compte que la rotation est accrochée tous les 5 degrés. En effet, observez le chiffre de déplacement 5, 10, etc. Ok, pour remettre à zéro, il suffit de remettre la valeur ici à 0. Pour personnaliser l'accrochage, curseur de droite, et vous avez ici angle. Je vais mettre par exemple 45 degrés, je valide. Je ferme. Et maintenant quand je tourne, je suis tous les 45 degrés. Bien. Je vais faire 0 et 0. Ces menus, en fait, options d'accrochage ici de snap, radius, de angle ou autre, Mais en fait, on les retrouve tout simplement en faisant curseur de droite ici, option, et on retrouve angle. Je vais remettre à 5 vu que c'était la valeur par défaut. On a le pixel, la couleur de ce que l'on voit, c'est-à-dire lorsqu'on déplace, vous avez vu qu'il y avait une cible bleue. On peut choisir comme ça son épaisseur et sa couleur. Pour rappel, Shift bouton de droite. Grid and Snap Setting, vous retrouvez exactement le même menu. Nous allons maintenant dans Home Grid. Home Grid, Grid Spacing, je vais mettre par exemple 10. Voilà. On va mettre euh, dans la vue perspective euh, 5 fois plus grand. Donc elle est 5 fois plus grande. On va faire 10 fois. C'est donc son extension. Si je zoome dans la vue. Je vois ici son extension de chaque grille. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. 10 sur 10. De 10 cm. Je vais mettre 5. Ok. Ici, c'est une division que l'on voit en reculant. Alors on va s'amuser à regarder un petit peu maintenant différentes autres choses. Je vais mettre par exemple 10. Voilà. Donc là, il n'y a plus de division. La division qu'on voyait en reculant tous les 5 ben, ne se voit plus. Donc ça, on s'en fiche un peu généralement, en tout cas moi. Euh, je vais faire tous les centimètres. Voilà. Mais tous les centimètres 10, ça veut dire que ma grille fait maintenant plus que 10 cm. Si je fais 500, voilà. J'ai une grille avec X division. Je vais remettre par exemple 5 ici. Voilà. Et si je zoome, je vois que ma grille. A maintenant un snap tous les centimètres ce qui permet d'avoir une précision tous les centimètres et l'extension de la grille je vais remettre une extension à 100 voilà tous les centimètres bien sûr tout ça euh, va influencer l'accrochage snap vous avez des accrochages gris, pivots, perpendiculaires, par sommet, par segment ou par face. Sur les lignes de la grille plutôt que sur les points de la grille. Sur la boîte englobante, sur les tangentes, sur les points finaux, au milieu des points ou au centre des faces. Nous allons utiliser énormément ce genre de choses lors de nos exercices de manipulation et surtout de modeling. Vous avez un accrochage standard sur les géométries ou NURBS. Nous n'utilisons pas le Nord, nous allons donc rester sur un mode d'accrochage standard. Voilà pour ce qui est de la personnalisation de votre grille. Bien, nous allons commencer maintenant par la création d'objets primitifs. Alors par défaut, créer 3D standard primitif. On a ici différents types d'autres objets, mais ce n'est pas le moment. Alors, on va voir les standards primitifs. Dans les standards primitifs, vous avez les boîtes, les cônes, deux types de sphères, des cylindres, des tubes, des torus, des pyramides, des tipodes, des plans. Okay. Bon, bien sûr, le but, et vous commencez à me connaître, euh, c'est d'apprendre à apprendre. Donc on ne va pas tout, 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 tout détailler, sinon vous allez acheter un DVD qui fait 20 heures, mais il n'y aura que 5 heures de constructif. Donc ce n'est pas tout à fait le but. Je vais revenir sur mes couleurs et demander d'assigner un randomise couleur pour qu'on voit un peu mieux les différents types d'objets, sans plus. Lorsque vous créez une boîte, vous n'avez pas grand-chose. Simplement que la hauteur, ok, nous avons déjà vu ça, et le nombre de segments. Pour voir correctement le nombre de segments, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur F4 lorsque maintenant nous allons commencer à créer les objets pour qu'on voit les segments dessinés par-dessus le lissage et le reflet. Je vais agrandir cette vue. Très bien. Je peux générer automatiquement les coordonnées de mapping, c'est-à-dire que cet objet primitif sera capable de recevoir automatiquement les images, soit déposées par l'explorateur de Windows ou via l'éditeur de matériaux que nous n'avons pas encore vu. Real World Map Size, c'est surtout pour les architectes, c'est-à-dire que la taille de la texture va s'adapter réellement à la taille de l'objet. N'oubliez pas de vérifier bien Unit Setup. Regardez, mon cube fait quand même déjà 2,50 m. Keyboard vous permet de rentrer au clavier euh, différents euh, principes, la hauteur, etc. du cube. Attention, lorsque vous désélectionnez l'objet, ce que vous faites n'aura plus d'effet sur l'objet. Il faut venir dans Modifier pour pouvoir changer ses aspects. Le keyboard, les entrées keyboard d'un objet ou autre, c'est avant sa création. Donc lorsqu'il est créé, bah c'est un peu fichu. C'est surtout pour le suivant. Généralement, on utilise rarement, euh, sauf je veux dire, les, les personnes euh, d'architecture ou autres qui aiment bien beaucoup de précision. Vous avez une boîte en création euh, libre sur les proportions, ou vous avez la gestion d'un cube automatique. Vous pouvez remarquer que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, lorsque vous basculez en déplacement, c'est-à-dire move, le point pivot se trouve à la base. Le point pivot est toujours tributaire de la création de l'objet, c'est-à-dire du bas au bas vers le haut. Attention, je suis en mode cube. Box du bas vers le haut. Dans ce cas-là, le point pivot se retrouvera à la base de l'objet. Bien. Box du bas vers le haut. Vous remarquez aussi qu'il garde l'historique du nombre de segments. Cone du bas vers le haut. Et puis, je maintiens la souris et je détermine la pointe. Remarquez, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez créer, créer et arrêter tout de suite la création. OK Voilà, même si ce n'est pas au point. En effet, n'oubliez pas de créer rapidement afin de retourner dans Modifier. Pensez à la rapidité en termes de production. La première phase créée, crée forcément le point pivot. Exactement à l'instar de la boîte. Alors, créer rapidement parce que vous pouvez changer après la taille du dessous. La première phase créée. Et la taille du dessus. Donc vous pouvez comme ça rapidement faire votre cône. Le nombre de segments en hauteur et le nombre de segments sur le couvercle. Dans ce cas-ci, nous n'avons qu'un seul couvercle, c'est en bas. Si vous avez deux couvercles, c'est-à-dire que le haut n'est pas égal à 0, mais plus, le cap segment s'adapte en haut et en bas, tout simplement. Le tour, le nombre de segments autour. Lissé ou non, qu'est-ce que le lissage Alors ça c'est assez intéressant. Le lissage c'est la manière dont la lumière passe de face en face. Pour une meilleure compréhension, je vais appuyer sur F4 pour enlever la subdivision. Et on remarque que l'objet n'est pas lissé, c'est-à-dire que la lumière ne passe pas correctement de face en face. La théorie du lissage on le verra par la suite avec le smooth et les normales. Smooth, la lumière passe correctement de face en face. Slice on, c'est vous permettre de couper votre cylindre du début en fin. Si je réduis euh, son cylindre, pardon, c'est un cône. Si je réduis comme ça la taille, hein, okay, ça nous donne des aspects assez intéressants pour faire, par exemple, une présentation graphique. Il est à noter que toutes les transformations que vous faites sont sans aucun problème animables. En effet, si vous cliquez sur Autokey, que vous positionnez sur la ligne du temps, toutes les modes de création sont entièrement animables. Le nombre de côtés, le slice, okay. le segment du bas, le segment du haut et sa hauteur. Et on retrouve comme ça toutes ces valeurs entièrement animées. Il suffit tout simplement de cliquer sur Autokey. Donc faites très attention si Autoki est actif. Euh, N'oubliez pas que vous créez des clés surtout. Les clés sont les termes d'animation. Les clés sont symbolisées par des couleurs rouges. C'est en fait chaque étape de l'animation. L'ordinateur calcule toutes les étapes intermédiaires. On parle donc dans ce cas-ci de keyframing. Ce n'est pas le but bien sûr, mais bon, tant qu'à faire, autant se cultiver un petit peu. Je vais supprimer cet objet. Je vais continuer mon aventure dans Créer Standard Primitif Sphère. Vous avez une sphère et une seconde sphère. Vous direz quelle est la différence entre les deux sphères A priori, aucune. Pas du tout. Si j'appuie sur F4, je me rends compte que j'ai une sphère constituée ici de rectangles, ou de carrés, ou de triangles. En effet, au fur et à mesure que je me rapproche du noyau de soudage des deux extrémités, ben les carrés ne pouvant plus rester carrés, se transforment progressivement en rectangles, puis par la suite en triangles. Ce qui peut être fâcheux pour certains aspects. Dans ce cas-ci, la sphère est constituée uniquement de triangles, toutes les faces sont donc égales. La première sphère s'appelle sphère et la seconde géosphère. Observons de plus près la création des sphères. Je vais faire un reset de ma scène et je vais créer une sphère. À la création de la sphère, si je fais Move, vous remarquerez que le point pivot se retrouve au centre de la sphère. Vous pouvez modifier et demander que le pivot soit à la base. Ce qui permet comme ça d'avoir le pivot positionné à la base de la sphère par rapport à son ordre de création. Et ça influence comme ça toutes les transformations. Je vous rappelle, les transformations, c'est position, rotation, échelle. Vous pouvez penser à ce processus avant sphère. Activer Bass to Pivot pour que le pivot de la sphère se fasse toujours en bas. Ce qui est intéressant lorsqu'on va utiliser par exemple l'autogrid pour que toutes les sphères soient bien positionnées. En effet, si vous oubliez Bass to Pivot et que vous activez Auto Grid, à ce moment-là, ce sera par rapport à l'intérieur, au centre de la sphère, et on aura comme ça une pénétration, puisque le pivot est au centre de la sphère. Donc basse ou Pivot est assez intéressant. Je vais enlever Autogrid. Autre chose dans la sphère d'assez intéressant, Hémisphère. On peut toujours le faire après ou avant. Je vais le faire après pour qu'on comprenne un peu mieux. C'est simplement une sphère qui est en demi. Et on a ici les proportions. 0,5 étant tout à fait la moitié. Et forcément, au-delà ou en deçà de 0,5, vous modifiez. On a ici euh, le 0,5 en hémisphère qui coupe le squash. Ok, est un autre principe. Après, on a aussi le slice. Le slice, quant à lui, permet de couper la sphère. Donc on voit bien ici, exactement comme on avait vu avec le cône auparavant. Tous ces paramètres peuvent être pensés avant la création. Hémisphère, je vais rentrer au clavier 0,5, je clique, voilà. Et j'ai comme ça des demi-sphères. Oups, ne pas oublier de remettre le paramètre. Ok, cylindre, bah comme son nom l'indique, c'est un cylindre. On retrouve exactement toujours les mêmes paramètres tube, premier cercle, deuxième cercle pour faire l'épaisseur et l'élévation. On retrouve donc toujours le même processus. En effet, pour rappel, le processus est celui-ci. On crée d'abord les faces qui vont être élevées, c'est-à-dire les faces intérieures. Puis par la suite, on fait l'élévation. Autrement dit, d'abord, comme c'est un tube, les deux cercles concentriques, puis l'élévation. Et on peut après par la suite retourner dans modifier et modifier à loisir les Paramètres de l'objet. Donc ne perdez pas de temps à essayer d'être parfait au début, puisque par la suite vous pouvez revenir d'en modifier. Je reviens d'en créer. Tube, torus, c'est une bouée, avec toujours le même principe. Pyramide, bah écoutez, voilà, et on peut changer comme ça le nombre de segments. Regardez un petit peu à quoi ça correspond. Les tailles, ok, ne pas oublier que si vous modifiez le nombre de segments, appuyez sur F4 pour les voir, sinon vous n'allez pas tout bien comprendre. Tipote, nous avons fait, déjà fait joujou avec, et la tipote a des choses particulières, voir ou non le corps, la hanse, le bec verseur ou le couvercle. Très bien. Ainsi que le nombre de segments. N'oubliez pas que au maximum, on obtient une face de 250 000, euh, enfin un objet avec 250 000 faces. Il y a une particularité par contre, c'est le plan. Le plan est très 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 intéressant parce qu'il était développé au départ sous un OS qui s'appelait le DOS et c'était pour le jeu. Lorsque je fais un plan, j'ai des segments. Je vais appuyer sur ici, les segments 4, 4, très bien. Mais regardez par contre, j'ai ici la taille du segment, euh, du, du plan, et j'ai ici Render Multiplier. Si vous faites Shift Q, vous avez le plan qui est égal à ce que vous voyez dans la vue. Si dans le Render Multiplier, je mets par exemple 2, si je fais Shift-Q, le plan est deux fois plus grand. Je vais dans Modifier. Si je fais 3 et que je fais Shift-Q, il est trois fois plus grand. Et ainsi de suite. Donc, si je fais 20, par exemple, donc je mets le chiffre 20, je valide avec Enter, curseur de droite dans la vue pour désactiver l'entrée au clavier. Et j'ai mon plan. Qui est au rendu 20 fois plus grand. Ce qui est très intéressant pour faire des étendues d'eau. On verra par la suite bien sûr tout ça, surtout dans le cas des lumières. Des étendues d'eau ou autres plus grandes euh, que dans la scène. Ce qui m'évite comme ça d'alourdir. C'était un principe qui était utilisé pour le jeu. Attention, si vous faites une surface qui est 20 fois plus grande, je vais mettre des segments qui sont par exemple 2 et 2 pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Mon plan est divisé ici en deux segments. De chaque côté, on peut rappeler ça, on va dire en x et en y, vu que c'est de la 2D. Lorsque je fais un rendu, voici mon plan. La densité est égale à 1 alors qu'il est 20 fois plus grand. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que la densité de la subdivision est égale à celui de la vue. Autrement dit, même si la distance est 20 fois plus grande, la subdivision est toujours identique. Autrement dit, il n'y aura pas plus de subdivision au rendu. Ce qui des fois est un peu fâcheux lorsque ce plan subit des déformations, comme par exemple des vagues. Il va être impossible de déformer les vagues du plan parce que le plan n'a pas de segments à cet endroit. Les segments ne sont que ici. Donc, si vous voulez le même nombre de segments au rendu, vous devez multiplier aussi la densité par 20. Évidemment, dans ce cas-là, voilà le total des faces. Et lorsque vous faites un rendu, c'est forcément un peu plus long. Ne perdez donc pas de vue ce principe. Nous venons de voir donc quoi Mais Tout simplement les formes primitives, okay, avec une particularité pour le plan, et surtout différents types d'options. À retenir donc, lorsque vous créez une forme, si vous n'êtes pas complètement satisfait, ne perdez pas de temps à aller directement dans Modifier afin de changer sa taille, ses attributs. Et si vous voulez réaligner rapidement, n'oubliez pas dans Edit, Transform Toolbox, Center Object directement et se repositionne au centre de la vue. Les primitives et les primitives étendues. Nous venons de voir les primitives avec éventuellement leur choix de couleur et leur accrochage en termes d'autogrid. Et si vous cliquez ici, toujours en 3D, vous retrouvez les primitives étendues. En effet, il est important à noter que lorsque vous êtes sur l'onglet Créer, vous retrouvez différentes choses à créer. Des assistants, des caméras, des spacewarps, des, des systèmes, des lumières de la 2D et ici nous sommes en 3D en 3D vous avez par défaut les standards primitifs si vous cliquez sur euh, cette icône vous allez retrouver comme ça différents types d'objets 3D bien nous avons vu les standards primitifs nous allons voir maintenant les extended primitifs quand euh, je dis primitifs tout simplement donc voilà alors écoutez, là franchement, c'est vous à tester et à regarder. Parce que vous avez des choses pour, je dirais, artistes incompris. Voilà. Donc on peut modifier comme ça différentes choses. Tout ça est animable. Bon, c'est à voir. Chamfer Box, je dirais que c'est le plus intéressant, donc je vais y revenir par la suite. Oil tank, oui, pourquoi pas, on peut choisir comme ça euh, l'amorce, le, le, c'est-à-dire le, le, la manière dont ils se font, on voit plus que ça ressemble à une capsule de médicaments, ok, donc on amorce comme ça l'arrondi, euh, le nombre de segments, ok, bon voilà, on a des choses un peu particulières, voici, on a d'autres choses comme ça, ok, voilà. On a des, des zones qui permettent de faire comme ça des zones 2D, euh, des sortes d'explosions. Euh, on peut changer ça. Euh, voilà. Euh, avec des trucs qui viennent ici comme ça au milieu. Bon. Euh, oui. On a des extensions en L. Là, disons que pour les murs, c'est bien sympa. Des extensions en C. Voilà. Et d'autres choses comme ça. Euh, voilà, voilà. Bien. On va peut-être euh, s'arrêter là et on va regarder celui qui est le plus intéressant, à mon sens. En tout cas, qu'on peut utiliser. C'est le chamfer box. Je reviens, créer extended primitive chamfer box. Vous créez une boîte, vous montez et c'est tout. Vous ne vous occupez pas de rien. Vous cliquez jusqu'au moment qu'il euh, vous laisse la main libre. Alors je répète, je clique la basse, je monte, je bouge un peu la souris, je valide. Bien. Je vais revenir sur celui-ci. Je sélectionne et je vais dans Modifier. Je vous conseille généralement de créer, comme on dit toujours très rapidement, et puis retourner dans Modifier. Vous avez déjà remarqué comment je fonctionne à ce niveau-là. Le champ Fairbox est assez intéressant parce qu'il vous permet directement d'avoir des chanfreins, c'est-à-dire des arrondis aux extrémités. Pour ça, je vais appuyer sur F4 pour qu'on voit un peu mieux. Il n'y a pas de segment, donc pour l'instant, on peut considérer que c'est quand même très primitif. Je vais rajouter des segments sur la longueur, des segments dans ce sens et des segments dans ce sens. Bon, ben bah voilà, c'est très bien si on veut alourdir la scène. Mais ça ne change pas grand-chose étant donné que les bords sont droits, donc je vais tout remettre à zéro. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est dans cette zone chanfreinée je vais rajouter des segments. Et là, si vous rajoutez des segments, forcément, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous obtenez un arrondi sur les bords. Vous pouvez changer la taille de la boîte d'une manière traditionnelle, et le filet, ben, c'est la taille tout simplement du chanfrein. Si j'enlève F4 pour la subdivision, il faut avouer que c'est beaucoup plus esthétique d'avoir une boîte chanfreinée. Standard primitif qu'une simple boîte qui n'a aucune possibilité de chanfrein. Dans la création d'objets 3D, vous avez les standards primitifs, les primitives étendues, les objets composés, particules et autres. Bon, là, je veux dire qu'on va commencer la liste à l'envers pour une facilité de certaines choses. Alors, je vais commencer par le tout dernier qui est en bas qui est généralement fait pour les architectes. C'est tout simplement une gestion d'escalier. Attention dans l'ordre dans lequel vous créez. On a comme ça différents types d'escaliers. Euh, et oui, attention dans l'ordre dans lequel vous créez. Vous allez déterminer d'abord l'étendue okay, de la zone, puis les marches d'escalier, et puis on va monter. Donc faites très attention à ça. Créez premièrement l'étendue l'épaisseur des escaliers et puis vous montez. D'accord, sinon vous obtenez des choses un peu bizarres. De toute manière, encore une fois, c'est pas grave puisque vous pouvez sélectionner votre objet et modifier certains paramètres. Voilà, pour avoir une épaisseur dans l'escalier. D'accord, et une autre épaisseur dans l'escalier. Et puis on peut changer comme ça différentes choses ainsi que l'angle Yeah. Et rapprocher. Vous avez des tas de paramètres okay, qui vous permettent de rajouter encore et toujours des tas de petites choses. Okay. Et pour ça, je vous conseille d'aller dans Modifier et d'ajouter éventuellement ce que vous avez besoin. Je l'ai. Donc on va rajouter comme ça des rampes. On peut mettre une rampe à gauche, une autre à droite. Okay. Et différentes options. Une fois que vous activez ces options ici dans Général Géométrie, vous pouvez modifier tous ces autres paramètres en dessous. Vous pouvez fermer l'escalier, au cas où vous aurez peur du vide, et fermer vraiment en termes de boîte à cet endroit. Les distances, tout ça se gère bien sûr. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de, de souci. Vous pouvez gérer les subdivisions des escaliers. Euh, enfin, on peut vraiment gérer tout ce qu'on veut. Encore une fois, le plus simple, c'est de créer et de regarder okay, euh, vraiment euh, les manipulations et les modifications que vous avez. Comme type d'escalier, qu'est-ce que vous avez Alors ça, c'est un vrai bonheur pour les architectes parce que vous n'avez pas grand-chose à faire. Spirale, toujours pareil. Faites donc très attention à la création de départ, ou bien à ce moment-là, vous revenez tout simplement sur modifier. Vous pouvez rajouter, comme toujours, tout ce que vous désirez, avec des rampes, ok, sans aiguille d'une montre, sans inverse aiguille d'une montre, et reparamétrer comme ça tout ce qui vous intéresse. Je pense que le plus simple, c'est toujours de regarder, de créer, et puis de modifier. Et voilà, de plus en plus simple ou autre. Créer 3D et je suis venu directement tout en bas. Vous avez comme ça une collection d'escaliers faciles à créer. Revenons un peu à notre escalier. Donc le voici. Je vais le mettre directement au centre de la vue avec l'outil Transformation Toolbox. Center. Très bien. Cet escalier, je peux modifier ses composants comme je vous ai montré auparavant. Par contre, que se passe-t-il si cet escalier, je le convertis en poly À ce moment-là, je n'ai plus les composants et je peux tout simplement modifier différentes faces ou bien ces éléments. En effet, maintenant, je peux modifier d'une manière plus spontanée, on va dire, quoique c'est-à-dire d'une manière euh, en utilisant les outils de transformation traditionnels. Move, rotation, ou scale. Les objets qui sont généralement escaliers ou autres se créent comme cela. Voilà, donc tout simplement avec différentes options qu'on a vu tout à l'heure. Voici. OK. Puis je vais le placer avec transformation toolbox au centre et je vais le convertir en poly. Lorsque vous convertissez un objet, vous perdez son principe de création d'origine. Vous le convertissez en quoi Tout simplement en point, en segment, en forme ouverte, en face ou en élément. Les éléments sont les parties de l'objet qui n'ont pas de points en commun ce qui vous permet une modification peut-être plus aisée, voire différente, en tout cas non prévue par les développeurs. Par exemple, je pourrais maintenant modifier l'échelle plus simplement de celui-ci, de, de face, modifier la face qui est ici, tout simplement en sélectionnant ses composants et en déplaçant. C'est une petite euh, comment je veux dire, astuce qui permet rapidement de modifier ce qui pourrait m'intéresser okay. comme élément faisant partie d'un objet, on va dire, euh, 3D prédéfini comme l'escalier. C'est une petite anecdote, mais qui nous amorce tout doucement le concept d'objet primitif et de conversion vers un objet poli. Après nos petits escaliers, qu'est-ce qu'on a d'autre On va toujours aller partant du bas et remonter. Donc je suis bien ici sur les objets 3D. Je clique ici pour avoir tout ça, tous les menus et les propositions autres d'objets 3D, dynamique objet. Alors, dynamique objet sont souvent utilisés pour faire des choses de base. Il n'y a que deux types d'objets dynamiques damper, vous créez tout simplement et spring, vous créez aussi tout simplement comme d'habitude. Bien. Vous créez et vous laissez faire. Vous allez après par la suite d'en modifier. Vous connaissez maintenant mon principe. Vous pouvez modifier la hauteur, le nombre de tours ben vous avez compris, ceci est un ressort. Le diamètre, très bien. Sans aiguille d'une montre ou inverser le sens aiguille d'une montre. Le nombre de segments et de subdivisions du segment, bien. Etc. etc. Ce qui est intéressant, par contre, ce n'est pas ça. Pour l'instant, il est en libre. C'est qu'on peut lui demander de suivre des objets. D'où le terme Dynamic Object. Je vais créer maintenant, donc je quitte le mode modifier, je vais créer la 3D, mais des standards primitifs. Je vais faire une sphère et une autre sphère. Je sélectionne cet objet, simplement curseur de droite dans la vue pour quitter le mode création et je clique l'objet. Je clique sur cet objet dynamique, je retourne dans modifier. Il est en mode Free. Suivre des objets ou le pivot des objets. Object Top, pick Object Bottom. J'ai simplement piqué l'objet Sphère et la suite. Maintenant, si vous prenez la sphère, le sort s'adapte automatiquement. En effet, observons. Voilà pourquoi maintenant nous avons le terme object dynamique. C'est un objet qui crée automatiquement un, une dynamique comme un ressort. Pourquoi le terme, alors, euh, suivre object pivot Parce que c'est tributaire du pivot de la sphère. Pour modifier un pivot, rappel, hiérarchie, affect pivot only. Si je déplace le pivot de la sphère, vous remarquez que le, le ressort s'adapte. Je vais faire pareil pour l'autre sphère, et je quitte affect pivot only. Les pivots des sphères sont modifiés, et le ressort est attaché maintenant au nouveau pivot. Et ça, c'est pas mal. Des fois, si vous voulez faire des systèmes de pistons ou, euh, je veux dire, de ressorts ou d'amortisseurs de voiture, on peut sans aucun problème rajouter le nombre de tours et obtenir comme ça un ressort du plus bel effet. Bien. Revenons un peu, non pas à mon objet ressort, mais à celui-ci, le damper. Le damper, lui, euh, est plus ou moins pareil, sauf qu'il peut avoir des options en plus comme par exemple un petit ressort ou un, un soufflet on dirait plutôt. Donc on va regarder un petit peu tout ça, les positions, ok, la hauteur, ok bien. Alors là vous modifiez, vous regardez, à hein, chaque fois c'est toujours pareil. Alors lui, ben voilà, on va recommencer, donc on va faire cette fois-ci une sphère, mais réfléchissons un petit peu. Basse tout pivot, voilà, et une boîte créée de cette face vers le bas. Autrement dit, ici, j'ai le pivot qui est en bas et ici, j'ai le pivot qui est au-dessus. Très bien, je sélectionne mon objet, modifier, bount, objet du dessus, objet du bas. Comme les pivots sont bien mis, en toute logique, lorsque je vais prendre la sphère et que je vais la positionner au-dessus, je n'aurai pas de souci. L'alignement se fait correctement par rapport à la boîte, puisque le pivot de la boîte est au-dessus. Et correctement à la, par rapport à la sphère, vu que le pivot de la sphère est en bas. Et j'obtiens tout simplement un piston avec un soufflet. Voilà le principe des objets dynamiques. Attention, lorsque vous sélectionnez un objet dynamique, si vous le convertissez en poly, il perd toutes ses propriétés dynamiques. Autrement dit, <laughs> le dynamisme ne suit plus. Donc évitez de convertir votre objet en poly laissez-le bien en termes de dynamique. On verra par la suite qu'on peut ajouter un modificateur polygonal, et c'est là la grande philosophie de 3D Studio Max. Autre type d'objet propre à l'architecture et l'engineering standard primitif AEC. Les objets AEC, les extensions AEC, sont faits généralement pour les architectes. Vous avez des murs Alors les murs sont vraiment très simples à faire parce qu'il suffit de cliquer. Et puis chaque fois que vous validez votre clic, que vous remettez un clic, un clic, pour marquer que automatiquement vous allez avoir une soudure qui va se faire. Vous avez ici une ouverture, donc on voit bien ici l'angle qui se fait, ok Parce qu'il ne sait pas encore dans quelle direction vous risquez d'aller. Donc tant qu'il ne sait pas dans quelle direction vous risquez d'aller, ben, l'angle ne se ferme pas. Par contre, dès que je valide, Hop, l'angle se ferme. Vous arrêtez la création avec le curseur de droite et vous avez vos murs pour le plus bel effet. Attention, les murs font 2,50 mètres de haut ici pour le moment, on peut les diminuer. Alors ça c'est pas mal parce qu'on va commencer déjà maintenant donc à travailler simplement avec le wall, donc les murs. Je vais faire un reset. Je vais donc faire une boîte. Créer la boîte vers le bas. Je vais revenir ici dans mur AEC wall AutoGrid. Et automatiquement, je vais faire mes cloisons de ma pièce. Voilà, j'arrête la création. Je continue. Très bien. Il n'y a pas de souci. Voici mes cloisons qui sont faites. Pour réduire la taille je vais par exemple aller dans Modifier. Ok. Je peux attacher ou attache multiple. Alors qu'est-ce que c'est qu'attacher ou attache multiple C'est Attacher avec l'autre mur. Maintenant, tous les murs sont identiques. Identiques dans la gestion. CTRL Z. Si j'avais cliqué sur Attache multiple, il m'aurait proposé tous les murs compatibles. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en effet, je peux comme ça continuer à créer des murs. Voilà. Ici, j'ai oublié de fermer la pièce, par exemple. Le fait d'être en autogrid, c'est vraiment très bien. Hein, parce que ça me permet d'aligner directement par rapport à la boîte. Je reprends mon mur d'origine, modifier, attache multiple, et je retrouve les deux autres murs que je viens de créer. Attache. Ils vont tous obtenir la même couleur. Ils seront tous dans le même espace objet. Curseur de droite, scale. Et je peux réduire tout simplement la hauteur. Je profite pour faire un petit rappel. Escalier. J'ai un escalier de base. Je suis en auto-grid toujours. Et voici mon escalier qui est créé. Ouais, donc avec ce genre d'outils, de, de, c'est vraiment très rapide. La création de mur n'aura plus de secret pour vous. Qu'est-ce que nous proposent d'autres les AEC étendus Eh bien, des plantes. Nous voici dans notre mur. Je vais agrandir la scène. Donc Alt W pour agrandir la scène et G pour cacher la grille. Bien. Foliage. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez différents types de plantes. On va voir un petit truc assez amusant. Ici, si vous avez une petite tige noire, ça signifie que vous pouvez encore continuer plus bas. Vous pouvez aussi éventuellement agrandir. Ok, sur le côté de la fenêtre. Pour ça, il suffit simplement de glisser la souris. Et faites très attention toujours au pointeur de la souris. Là, je suis en mode création. Et là, je suis simplement en gestion du menu. Vous voyez Très bien. La souris change de forme. On a ici une collection d'arbres et d'arbustes. On va essayer de mettre ceci. C'est marrant. Je clique et je n'ai plus qu'à cliquer. Comme je suis en auto grid, je peux directement choisir où je veux mettre ma plante. Ma plante est créée. Attention, c'est une esthétique architecture. Donc, de là à dire que c'est hyper réaliste, faut quand même pas rêver. Bien, la plante est créée. Je peux en mettre maintenant un yucca. Pardon, je mettrai bien ça sur le palier. Voilà. Oula. Curseur de droite. Scale. On va peut-être un peu réduire. Lorsque vous créez une plante et que vous êtes en édition de la plante, la plante précédente, quant à elle, s'affiche d'une manière optimisée. Vous remarquez que la première plante créée est affichée d'une manière optimisée, ce qui évite d'alourdir la scène. Bien. Lorsque vous désélectionnez tout, les deux plantes s'affichent d'une manière optimisée. Retournons un peu ici. J'ai Plante Librairie. En effet, lors de l'installation de 3D Studio Max, vous avez différents types de plantes. Je me laisserai bien tenter par des plantes japonaises, moi. OK. Et vous pouvez retrouver comme ça des librairies. Les paramètres. Alors, les paramètres sont toujours par eux. La densité, etc., etc. Le plus simple, quand même, c'est de sélectionner votre plante, de retourner dans Modifier. Et vous retrouvez directement ces paramètres, ainsi que la hauteur, la densité. Ok. Bon bah là, elle n'a pas eu beaucoup à boire. Elle a eu beaucoup à boire. Ok. L'aspect aléatoire pour éviter d'avoir toutes les plantes qui se ressemblent. Ok. La taille. Bon, j'aurais pu changer la taille de cette manière. Avoir différentes choses ou non, relatif à sa création. Bien. Et alors bien sûr, hein, toujours euh, les optimisations et les détails affichés. Attention, ceci, l'optimisation d'affichage n'influence pas le rendu. Plante dans le mur, ce n'est pas terrible. On va donc changer sa place. Bien. Voilà par exemple typiquement euh, le type d'outil. Okay, que l'on peut utiliser pour l'architecture euh, basique, hein, bien sûr. Donc euh, on est quand même loin de l'hyper-réalisme. Mais pour certains aspects, ça peut suffire. Ou pour donner l'idée de... Voilà pour ce qui est des AEC Extended. Il nous manque maintenant le rail, ou je dirais plutôt les barrières. Après les plantes, comme promis, les rails. Alors on retourne dans AEC Extended. Et on a les rails. Alors les rails, ben, vous pouvez créer tout simplement des rails. Hop, voilà. Alors faites attention, c'est donc d'abord la distance, puis la hauteur. Ne créez pas en montant, vous allez avoir une tige où on ne comprend pas trop grand-chose. Oups, reset. Et je continue. On va regarder un petit peu euh, ce rail, en tout cas cette barrière plutôt. OK. Je vais créer la longueur et monter. Qu'est-ce que j'ai en option en option, vous n'avez pas grand chose. De base, quoique. Regardez bien, le profil est carré. Round, le profil est rond. En haut. On a comme ça la distance. OK. La taille, l'épaisseur. Et la hauteur. Le profil est toujours carré. Rond. On voit maintenant à quoi ça correspond. Le profil est rond. C'est pour les deux postes extérieurs. Je peux faire une épaisseur un peu plus grande et voir changer aussi son aspect. Etc. Les piquets solides ou les piquets. Bien. Je peux modifier ici l'espacement entre les piquets avec un menu qui nous permet de dupliquer le nombre d'espacements automatiquement. Ce menu, vous pouvez remarquer, vous le retrouvez à différents endroits, qui permet toujours d'espacer bon, trois gros piquets avec une possibilité de placer plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire une distribution non homothétique, mais plus concentrée vers le dans un sens et plus concentrée dans l'autre. C'est un choix bien sûr. Et on retrouve ce menu de distribution. Ok, voilà, tout simplement. Je vais réduire un petit peu le nombre. Ok. Par contre, il y a une option très intéressante Pick Rallying Path. Alors, piquer un chemin. Bah malheureusement, nous n'avons pas encore vu comment créer un chemin. Alors, nous allons le faire en vitesse. Le but ici n'est pas d'apprendre à utiliser une ligne, mais de le faire rapidement. Créer. Un chemin, c'est de la 2D. Créer 3D, créer 2D. Je répète, lorsque vous créez, vous avez différentes options. La 3D, la 2D. Les caméras, les lumières, les caméras, les assistants, les space warp et euh, différentes euh, combinaisons. On était en 3D, nous devons passer en 2D. Nous allons donc créer la 2D. Tout simplement, vous êtes en ligne. Lorsque vous créez une ligne en vue perspective, vous êtes devant une certaine catastrophe. En effet, votre point peut être à 3 cm de vous et le second point peut être à 10 années-lumière de vous. Je vous conseille de cocher Auto-Grid dans le cas où vous désirez absolument créer dans une vue perspective. À ce moment-là, il va se mettre sur la grille. Pour créer une ligne, le but du coup, on n'est pas ici de créer une ligne, mais de vous aider. C'est simplement un clic, un clic. Un clic. Si vous faites des clics rapidement, vous obtenez des segments de droite. Si vous cliquez et vous maintenez la pression, vous avez un arrondi. Pour arrêter la création, c'est curseur de droite. Le but, bien sûr, n'est pas de faire une ligne. Je répète, je viens de supprimer avec Supprime au clavier. Le but est de d'utiliser une ligne pour cet objet primitif étendu propre à l'architecture. Créer 2D ligne. Cocher Auto Grid si vous créez en vue perspective. Bien. Supprime. Si vous préférez créer en vue de dessus, top. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en auto-grid. En effet, vous êtes d'office dans une vue 2D. Et là, vous n'aurez pas les soucis de la profondeur. Ligne. Je clique. Je clique. Chaque clic me fait des segments de droite. Je clique. Je maintiens la pression. Je ne relâche pas le clic de la souris. Et j'en arrondis. Je clique. Je clique. Vous n'en faites pas. Nous allons passer par les exercices bien après de perspective. Comment je peux faire maintenant Je sélectionne mon objet, donc curseur de droite pour arrêter le mode création, je clique sur l'objet avec le bouton de gauche de la souris, curseur de droite pour arrêter la création et clique avec le bouton de gauche pour sélectionner mon objet. Modifier, Pick Rallying Path et voilà. Évidemment, c'est un peu particulier étant donné qu'il n'a qu'un seul segment. Si vous rajoutez des segments, il pourra s'amuser à suivre beaucoup plus correctement, votre chemin. attention à l'épaisseur. Hein, bien sûr, pour que tout ça soit un peu plus correct. la position. la position. le profil, l'extension, etc., etc. Donc on peut comme ça vraiment gérer okay, tout ce que vous désirez yops, pour obtenir des choses je dirais un peu plus sympa, esthétiques et tout et tout. Bien. Sachez aussi autre chose, c'est que si vous avez placé ça sur un chemin, que vous sélectionnez votre chemin, vous pouvez modifier le chemin pour que la barrière suive automatiquement modifier le chemin c'est pas très compliqué c'est toujours pareil créer modifier chemin on verra bien sûr bien après ok la création de chemin un peu plus complexe ici c'est simplement une découverte de 3d studio max j'espère que vous êtes quand même satisfait de vous, vous rendre compte qu'il y a quand même énormément d'outils dans 3d studio max qui peuvent vous faciliter la création Anecdote assez amusante, n'oubliez pas que tout ça est animable, y compris le déplacement des points. Une barrière animée. On verra peut-être éventuellement une application par la suite. Bien, quittons un peu les AEC pour voir un peu ce que Max nous propose d'autre. Alors. Le problème ici, c'est que les standards primitifs sont facilement compréhensibles, les standards primitives compréhensibles et attestés bien sûr. Bah, je crois que les escaliers, il n'y a pas eu de soucis. Les objets dynamiques sont amusants. AEC bah, vous permet de faire des, des plantes, des murs et on vient de voir des barrières. Bien. Mental Ray, quant à lui, je vous enverrai vers le DVD propre à Mental Ray. Bon, on pourra le voir par la suite éventuellement dans les autres euh, comment je dire, euh, chapitres, mais survolé étant donné que dans, ici vous avez des collections possibles sur le DVD de Mental ray. Les NURPS et les patchs sont pour les objets surfaciques, pour les patchs GRID, et les NURBS sont simplement pour créer des surfaces NURPS. Nous n'allons pas utiliser ce type de choses étant donné que nous nous restons en mode de modélisation polygonale. Particules système, nous allons vraiment survoler les particules dans d'autres DVD, mais ce n'est pas le but non plus de notre formation. D'ailleurs, je pourrais barrer mon taleré, vu que ce n'est pas le but non plus des modélisations de base. Les objets composés ont besoin, euh, pour voir les choses très intéressantes et constructives, euh, d'utiliser de la 2D. Nous n'avons vu que vraiment survoler des lignes, donc ce n'est vraiment pas maintenant qu'on est apte à suivre les objets composés. Nous allons bien sûr les voir par la suite. Il ne nous reste donc plus que les doors et windows. C'est-à-dire les portes et les fenêtres. Allons-y. Choisissons donc doors. Vous avez différents types de portes. Attention à l'ordre de création. Voilà. C'est-à-dire que la création que je viens de faire est très simple. Si je prends une porte à pivot, je crée la distance de la porte, l'épaisseur du chambranle et la hauteur de la porte. Je peux maintenant ouvrir la porte. <laughs> et oui, tout simplement. Je peux avoir une double porte. Ok. Et inverser le sens d'ouverture. On ne sait jamais si les pompiers y passent pour sortir plus rapidement de la pièce. On a comme ça, toujours partant du même concept, différents types de portes avec différents types de fermetures et d'ouvertures. À glissière, en accordéon ou à battant. Après les portes, passons aux fenêtres. Donc, forcément window. Là c'est tout à fait pareil. On crée la distance, l'épaisseur, la hauteur. Et là bien sûr, vous avez aussi, comme d'habitude, différents modes d'ouverture. A vous essayer aussi de voir différents modes de proposition pour toutes les ouvertures. Donc ici, panel counts, le nombre de panneaux d'ouverture de ce type de fenêtre. Si je reviens dans la création fenêtre, toujours pareil, la distance, l'épaisseur, la hauteur. Et lorsque vous allez ouvrir, vous allez pouvoir comme ça choisir différents modes de fenêtre. Évidemment, ici, c'est une fenêtre fixe, il n'y a pas d'ouverture. Donc faites attention quand même au mode de type de fenêtre que vous utilisez pour voir s'il y a des ouvertures. Autrement dit, si vous ne voyez pas tout simplement Open, ça veut dire que c'est une fenêtre fixe. Ceci dit, rien que dans le nom, c'est annoncé. voilà différents modes de fenêtre ah, on va pas trop s'éterniser hein, je pense que là on a tous compris les modes de fenêtre que max peut vous proposer et voici open avec bien sûr certaines variables ok Assez amusante. Ici je vais utiliser l'accrochage. Petit rappel attention je vous invite à aller voir le chapitre concernant l'accrochage. Alors l'accrochage si je fais shift bouton de droite je retrouve les possibilités d'accrocher à différentes choses face je désactive grid point alors le grid point à ce moment là lorsque je vais créer une boîte il faut activer l'accrochage avec s pour qu'il soit pris en compte j'ai ici la boîte qui se crée par rapport au point de la grille. Je répète, S pour changer oui ou non l'accrochage. Donc là, il est activé. Et pour paramétrer l'accrochage, c'est Shift, bouton de droite, et on choisit sur quoi j'accroche. Bien, ce petit rappel euh, va nous servir pour l'exercice qui va suivre avec d'abord les AEC extended. Je vais prendre les walls. J'appuie sur S, je suis en accrochage pour rappel Shift bouton de droite gris. Je crée de cette manière un mur droit. J'arrête la création avec le curseur de droite. Je vais basculer en création window ou d'or, plutôt une porte tout à fait. Voilà. Shift bouton de droite, je désactive la grille, shift, c'est-à-dire majuscule, bouton de droite, et je prends face. Je vais créer une porte à pivot sur la face ici. Voilà. J'arrête l'accrochage pour créer l'épaisseur. S pour désactiver. Et je regarde dans les autres vues. Vous voyez donc cette vue-ci. Je regarde dans les autres vues le fait d'avoir la même épaisseur. Maintenant je monte. Et voilà. J'ai ma porte qui est faite. Je vais changer un peu la hauteur de la porte. Je n'ai pas fait très attention. Et regardez, lorsque j'ouvre la porte, automatiquement le trou dans le mur est fait. Et ça marche bien sûr avec les fenêtres et tout, sans aucun problème. Passons à la création de lignes. Alors, les lignes appelées des splines. Créer 3D, shape, ligne. En mode spline. Dans les lignes, vous avez aussi des extensions. NARP, ce n'est pas pour nous, mais des lignes euh, étendues, des splines étendues. Nous allons nous occuper des splines. Nous avons les lignes, des cercles, des carrés, etc. etc. Nous allons commencer tout simplement par les choses prédéfinies. Nous allons venir par la suite pour la ligne euh, qui va nous intéresser le plus, bien sûr. Elix est une ligne. Vous créez et vous montez et vous avez comme ça un tour. Ok. Alors je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. J'ai au clavier pour rappel et je vais modifier sa couleur. Voilà, comme ça on a beaucoup plus de contraste. Lorsque cette ligne est créée, vous pouvez tout à fait la modifier. On va modifier son cercle de départ et son cercle d'arrivée. C'est toujours dans une quadrature. Sa hauteur et le nombre de tours contenus dans son espace objet. En effet, si j'observe, j'ai ici le cercle de départ c'est-à-dire le rayon de départ, le rayon d'arrivée qui est déterminé par rayon 1, rayon 2, la hauteur de l'élévation dans le sens de création, et le nombre de spires dans turn. Le bias est la concentration des spires plus vers le haut, plus vers le bas. Bien. Toutes les lignes ont une particularité, le rendering. Qu'est-ce que c'est cette particularité Alors, ce rendering est assez amusant. Il vous permet en fait d'être visible au rendu et pas forcément au viewport. En effet, si je fais un rendu, voici la ligne. Il est difficile de la gérer sans voir ce que ça va donner. Donc, j'active viewport aussi. Bon, il est un peu stupide de désactiver rendu et ne pas l'avoir okay, et l'afficher au viewport. Donc, généralement, je fais les deux. Je n'utilise pas les mappings, je n'utilise pas tout ça pour le moment. Je vais m'occuper surtout de la taille. Ici, l'épaisseur de la ligne et le nombre de côtés. 12 segments, 3 segments. Bien. Ici, je mets très peu de segments. Par définition, j'en ai mis 4. Angle permet comme ça de faire tourner les segments par rapport à la ligne d'extrusion qui était la forme de départ. C'est radial ou c'est rectangle Bien sûr, radial va dépendre du nombre de côtés. Rectangle, forcément, c'est 4. Je peux néanmoins choisir la taille du profil ainsi que son angle de rotation. Son aspect proportionnel. Si je désactive proportionnel, euh, si j'active proportionnel, évidemment, là, il n'y aura pas de souci. Je ne peux pas euh, modifier séparément la longueur et la largeur du rectangle du profil. Et on retrouve bien sûr les paramètres habituels. Sens inverse aiguille d'une montre, bon, ça nous avions déjà vu. Voilà pour ce qui est du rendering des lignes. Je reviens pour la création elix Création méthode edge center. Edge par rapport au bord et Center par rapport au centre de la forme. Bon, ça n'influence pas grand-chose la forme finale, mais plutôt sa création. Vous remarquez que les paramètres de rendering restent actifs pour toutes les formes qui vont suivre. Je vais passer en vue rapidement maintenant toutes les autres types de lignes, et nous allons nous attarder un peu plus sur la ligne complexe et pas des lignes prédéfinies. On va continuer donc maintenant notre aventure sur les lignes. Donc toujours création ligne, elix On va aller dans start une étoile. Ben là vous pouvez forcément changer la taille. Ok, je vais fermer euh, rendering et on a ici les différents paramètres, le cercle extérieur, le cercle intérieur, le nombre de points définis sur les deux, la distorsion. Donc, éventuellement, c'est tourner le cercle intérieur par rapport au cercle extérieur. OK. Et après, vous avez la possibilité d'arrondir les extrémités ou l'intérieur. Au départ, c'était une étoile de shérif et ça ressemble maintenant à. Euh, on sait pas trop quoi, une anémone ou une étoile de mer. Bien. Donuts, bah, comme son nom l'indique, c'est un cercle avec un autre cercle à l'intérieur. Donc, c'est deux cercles concentriques. Ellipse, ben c'est un cercle, ou plutôt une ovale, une ellipse. Un cercle, ben c'est un cercle. Donc vous voyez comme quoi on reste quand même très basique. Rectangle, c'est un rectangle avec une option particulière qui est l'arrondi aux extrémités. Alors des fois, vous allez vous rendre compte que le fait de créer comme ça une ligne, qui fait quand même 2 2m mètres sur 2 mètres 50 sur presque 1 mètre 90, enfin 90, pardon. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que les arrondis, on doit vraiment mettre beaucoup de valeurs. N'oubliez pas ce raccourci, contrôle sur les doubles flèches pour multiplier par 10 les valeurs. Évitez toujours les interpénétrations. Sinon, lors de l'extrusion, il ne va pas comprendre ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, et vous allez avoir une forme complètement incompréhensible lors du rendu. Donc faites très attention à ne pas avoir d'écrasement comme ça dans votre profil et des boucles. En effet, les lignes 2D, il est très important de bien les créer. Toutes les lignes 2D, par rapport au centre ou à l'ordre de création, l'orientation des faces va être par rapport à l'extérieur. Autrement dit, ce que je vous dessine ici, c'est la direction. Des normales, la surface qui va recevoir euh, les, la lumière et le shading, les textures, etc. Si vous créez une interpénétration et des boucles, il va y avoir un gros problème. En effet, l'extérieur, ici, il n'y a pas de problème. L'extérieur, là, oui. Mais attendez, ça, c'est l'extérieur. Non, ce n'est pas l'extérieur. En effet, ceci est une erreur. L'extérieur est bien ici. Mais là c'est l'extérieur et il continue et donc il va pénétrer l'autre extérieur. Ceci est la ligne intérieure, voilà, ceci est une ligne intérieure, mais qui va pas recevoir, donc on va avoir l'impression de voir au travers. En fait, ça va être complètement incompréhensible lors de l'élévation, ce qu'on appelle généralement une extrusion. Donc ce sont vraiment des choses à éviter, c'est d'interpénétrer les profils 2D qui vont servir à une extrusion future. L'arc. L'arc est assez particulier en création. Vous devez déterminer une taille et puis vous avez l'arc à créer. Ceci dit, pour faire un arc de cercle, comme d'habitude, faites-le rapidement et puis modifiez tout simplement. Ok Voilà. Modifiez tout simplement les paramètres ici. Dans Modifier. Ok Où vous pouvez accéder aux paramètres de création de toutes les formes, 2D ou 3D. And gone. Quant à lui, c'est un profil ayant plusieurs côtés. 6, 4, 5, 6. Donc c'est un polygone ayant une valeur personnalisable de côté. Tout simplement. Section, c'est particulier. Nous verrons par la suite. Texte. Nous allons nous pencher sur le texte pour le chapitre suivant. Bien, bah voyons comme promis la création de texte. Donc je suis toujours en création 2D texte. Par défaut, voici le texte. Vous pouvez taper le texte comme vous le désirez ou aller chercher dans n'importe quel éditeur de texte, faire CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Lorsque vous créez le texte, faites attention là où vous allez cliquer ça va dépendre de l'ordre. C'est-à-dire que si je le crée ici, l'ordre de création va être dans la vue perspective. Si je fais dans la vue frontale, il va être en vue frontale. Si je clique là, il sera dans ce sens-là, ici et ici. Bilan, j'obtiens, en fonction de, de la vue où j'ai cliqué, différentes orientations du texte. Bien. Bon, on va en garder qu'un seul. File reset. Non, je ne vais pas garder ça. Je reviens sur création 2D, texte, CTRL-V et je vais mettre en vue frontale. Je vais agrandir la vue frontale avec Alt W et dézoomer tout simplement. Je vais enlever la grille avec G. Et je retrouve ici le choix de la taille du texte. De la séparation des caractères jusqu'à concentrer complètement tous les caractères. Ceci dit, euh, n'importe quelle gestion de typo fait pareil. Si j'avais mis plusieurs lignes, j'aurais pu gérer comme ça l'espacement entre les lignes. On a les justifications et les typos. Tout va dépendre bien sûr des typos euh, que vous avez au sein de votre installation de Windows. Tout simplement. Vous pouvez toujours mettre cocher rendering et pour avoir comme ça l'épaisseur. Alors l'épaisseur, c'est-à-dire que mon texte va devenir une sorte de tube néon. Ne pas oublier que vous êtes en mode fil de fer, F3 pour voir en lissage, P pour être en mode perspective, Alt bouton du milieu pour tourner et voir mon texte. Bien, donc là ici j'ai fait Shift Q pour le rendu rapide. Voilà pour la création de texte. Vous voyez comme quoi que c'est à mon sens pas très compliqué. Pour rappel, toutes les modifications que vous faites, comme par exemple la taille, la concentration est animable. Donc vous pouvez sans aucun problème animer chaque petite chose okay, qui sont ici. Donc ici je vais mettre une valeur de 0 au clavier. Je vais mettre une valeur maintenant négative. Pour concentrer vers l'intérieur, donc négatif, je vais faire moins 50, par exemple. Voilà. Peut-être un peu plus, moins 200. Ça, c'est un peu trop. On va faire moins 100. Voilà, très bien. Animé. On va s'amuser un petit peu. Et maintenant, je vais remettre 0. Et si vous remarquez, vous avez une clé, donc tout ça est entièrement animable. La taille est animable et donc on pourra comme ça animer les profils de d ou le texte tout simplement. Attention, je suis en animé, je change de typo. Ok, la typo, quant à elle, n'est pas animable. Donc ce sont ces paramètres qui sont animables tout simplement. Vous pouvez par contre ajouter ou corriger le texte sans aucun souci. Et il va s'adapter à l'animation que vous avez mis auparavant. Nous allons voir maintenant une particularité de création de lignes 2D, section. Pour bien comprendre section, nous devons d'abord créer un objet 3D. Très bien. Créer 2D, section. Je vais en fait créer un plan de section qui, lorsqu'il va rencontrer une 3D, va me créer tout simplement un plan de coupe. La position est importante, le recouvrement pas forcément. Vous remarquez que c'est simplement un prolongement sur ces deux axes okay, de création 2D. En effet, sa création est faite en 2D. En fonction de la vue que vous avez choisie, vous avez ici les deux axes du plan. Dans mon cas, vous avez Y et X à cet endroit. Le Z n'a aucune influence sur le prolongement x ou y, ce dans toutes les parties du plan 2D, ce plan de coupe, vous allez avoir une projection de ce plan sur les géométries 3D de votre scène. Vous pouvez comme ça le placer à loisir, voire le tourner comme vous le désirez. Pour créer ces plans de coupe, c'est pas très compliqué. Ici, je vais mettre la valeur à moins 90 pour être nickel pile poil. Modifier. Je vais le mettre ici. Create Shape. Je donne un nom. 1. Je continue. Create Shape. 2. Et ainsi de suite. Ok, lorsqu'on n'a plus besoin de ce plan de coupe, vous pouvez sans aucun problème le supprimer. Je prends ma 3D et je déplace et je retrouve ici tous les plans de coupe qui ne sont en fait rien d'autre que des lignes éditables. Voilà l'utilisation de base du plan de coupe. On va voir maintenant quelques particularités sur le plan de coupe. Alors je reviens sur la création de des sections. Ma forme 3D est toujours bien présente et je crée. Je monte ma section et automatiquement, on voit que ma section se projette jusqu'à l'infini par rapport à tous les objets. Bien. Quelles sont les options qu'il nous propose et options Ici, les options, c'est infini. Sélection, lorsqu'il va rentrer dans l'espace objet. Il va automatiquement sélectionner l'objet. Pour ça, il ne faut pas forcément rencontrer l'objet il faut rentrer dans son espace objet. Voilà. Ok. Je peux adapter manuellement. Et si je fais manuellement, je peux emporter avec moi cette sélection ou venir repositionner ma ligne et refaire update. Update. Ou bien par défaut, move et c'est en fonction de mon déplacement. When selection, à ce moment-là, il va garder la sélection de sa position et il va l'emporter avec lui. Tout simplement. Je peux faire create shape et ce sera par rapport à ma sélection qui vient d'être faite. Et je peux comme ça combiner sans arrêt. Donc maintenant, c'est un choix. Okay. de différents types de manipulations. Venons maintenant à la création de lignes. Créer 2D lignes. Alors pour ça on va voir quelques particularités ou quelques petites astuces, je dirais plutôt. Il faut avoir l'habitude. Je vais commencer à créer dans une vue frontale. J'active la vue frontale avec le bouton de droite pour ne pas commencer à créer ma ligne. Alt W pour agrandir ma vue. Lorsque je clique des segments de droite, simplement en simple clic de souris, j'ai une suite de segments de droite. Si je clique, je maintiens la pression sur la souris, je travaille en mode courbe. Là, ma souris, je maintiens toujours la pression sur le bouton de gauche de la souris. Je lâche, je clique, je maintiens le bouton sur la pression de la souris, je lâche et je continue à cliquer. Si je ne maintiens pas la pression de la souris, que je fais des simples clics, j'ai une succession de segments de droite. Bien. Je répète, pour faire donc ce type de forme, clic, segment de droite, un simple clic de souris et je déplace ma souris. Bien. Je calcule dans ma tête 1 carré, 2 carré, 3 carré, 4 carré, 5 carrés. Je clique. Je me mets à cet endroit. Je calcule dans ma tête 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, c'est du repérage. Hein. Je mets ici, je mets à cet endroit. Je clique avec la souris, mais je maintiens la pression sur la souris. Et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Un simple clic. Lorsque vous fermez votre forme, il vous demande si vous voulez fermer la forme. Bah ben oui. Voilà. Un des exercices simples pour voir si vous mémorisez bien les positionnements, la grille ou autre. C'est vrai que j'aurais pu être en accrochage gris, mais le but ici est de bien comprendre comment ça fonctionne par rapport à des segments de droite ou ce qu'on appelle des courbes de Bézier. En effet, lorsque j'ai créé, j'ai fait mon premier clic à cet endroit, mon deuxième clic à cet endroit, mon troisième et quatrième. Ça, c'est des simples clics de souris. Pareil pour celui-ci d'ailleurs. Par la suite, j'ai créé mon sixième point, mais attention, pour ce sixième point, j'ai maintenu la pression du curseur gauche de souris pour obtenir une tangente en courbe. Je repositionne au même endroit que la tangente entrante. La tangente sortante sera donc symétrique à la tangente entrante par rapport au point numéro 6. Revenons sur le point numéro 1. Et à ce moment-là, vous avez un message qui vous demande de fermer la forme. Ce point particulier, le numéro 6, est un point Bézier. Nous verrons par la suite que nous pourrons avoir des poignées qui vont me permettre de modifier la tangente entrante et la tangente sortante par rapport à ce point qui est géré en mode Bézier. Lorsque vous créez des lignes, il arrive souvent que vous êtes hors écran. Alors, ça, c'est vraiment pas un problème. Vous appuyez sur la touche I du clavier pour avoir votre curseur de souris en interactif. I. Vous dites oui, mais je ne vois plus ma forme. Faux. Rappelez-vous du Z. Je clique I pour être en interactif par rapport à la souris. Z. Et donc, on peut toujours travailler de cette manière sans aucun problème. Z. Je supprime. Je vais continuer ma création de ligne, reset, non. yes. En utilisant toujours la vue frontale, Alt W. Mais cette fois-ci, je vais utiliser l'accrochage de la grille. Pour rappel, Shift bouton de droite, grid point. J'active l'accrochage avec S au clavier création de des lignes. Et là, on remarque que je suis en création accroché à la grille. Je crée ma ligne d'une manière beaucoup plus aisée et plus rapide. Je remets à cet endroit, je maintiens la pression, je reviens. Close line. Voici un petit exercice qui va vous aider simplement à la création rapide de profil 2D. Ben donc nous voici devant notre forme. Alors pour les modifications de points, rien de plus simple. Notre forme est sélectionnée, nous allons dans Modifier. Vous pouvez basculer dans les différents sous-objets. Les sous-objets sont ce qui compose en fait ma forme. Vous accédez aux sous-objets de cette manière point, segment ou la forme entière. Vous pouvez y accéder aussi ici en cliquant sur le petit plus en face du mot line. Les sommets, les segments, les splines, c'est-à-dire la forme entière. Et il vous montre comme ça des présélections. Le point qui est jaune symbolise en fait le premier point de votre création. Vous pouvez accéder différemment. Curseur de droite, spline, segment, vertex, top level. Spline, segment, vertex, c'est-à-dire les sommets et le niveau au-dessus, c'est-à-dire votre espace objet. Pour accéder à un sous-objet, vous cliquez sur les points. Pour quitter le mode sous-objet, il suffit de recliquer là où vous avez cliqué. Donc, vous voyez comme quoi c'est relativement simple. Cette notion de sous-objet ou de composant est importante dans 3D Studio Max. Je vais choisir les points maintenant. Je peux prendre ces points-ci et simplement les déplacer. Pour les déplacer, n'oubliez pas d'appuyer sur W pour être en fonction de transformation move. Je dépasse l'objet facilement. Ce sous-objet point reste en mode corner, c'est-à-dire en segment de droite. Lorsque je prends un point bézier, j'ai ici sa poignée, et lorsque je le déplace, je déplace complètement toute sa courbe. Par contre, on va se retrouver face à un problème. Le problème, c'est la taille du gizmo de transformation. Pour rappel, le gizmo de transformation, c'est celui qui vous propose les déplacements, la rotation ou autre. Vous avez deux solutions, soit vous cliquez la poignée, mais lorsque vous cliquez la poignée, vous remarquez que vous activez uniquement le déplacement sur X. Donc à ce moment-là, il n'est plus possible de déplacer en hauteur, sauf si vous appuyez sur le raccourci clavier F8, où là, vous basculez sur deux axes. Si vous ne voulez pas, euh, ou si vous désirez travailler autrement, vous pouvez cacher le gizmo de transformation en appuyant sur X au clavier. À ce moment-là, vous n'avez plus de contraintes liées aux axes. Néanmoins, vous avez encore d'autres techniques. En venant ici en haut, lorsque vous êtes avec la main, okay, vous voyez ici que vous êtes à la main de déplacement, donc vous n'allez pas aller dans un menu ou personnaliser un icône. Vous êtes sur la main de déplacement, curseur de droite, axis contraintes. Et là, vous pouvez prendre le point et valider avant ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le déplacement sur deux axes. Généralement, je préfère le cacher, déplacer et le réafficher. Et là, maintenant, je fais vraiment ce qui m'intéresse. Ou n'oubliez pas F8 au clavier. Bien. Pour modifier les points ou leurs attributs, vous avez quatre propositions. Ces propositions se trouvent lorsque vous sélectionnez un point, curseur de droite. Bézier corner, Bézier, corner et smooth. Le petit repère ici vous montre que le point que vous avez choisi est en corner. Si vous mettez Smooth, c'est un lissage automatique par rapport à la tension ou la tangente pardon, entrante et à la tangente sortante. N'oubliez pas de l'ordre de création des aiguilles d'une montre pour cette forme. Autrement dit, ceci la tangente entrante, le point, et la tangente sortante. Lorsque vous êtes en Smooth, vous faites un lissage automatique sans aucun contrôle. Si vous voulez contrôler votre lissage, rebasculez en mode Bézier. À ce moment-là, vous pouvez gérer votre lissage en mode Bézier. Le mode Bézier, par définition, est symétrique. Vous remarquez que si je bouge une des poignées par rapport au point central, vous remarquez que l'autre poignée bouge d'une manière symétrique. Si vous l'êtes en asymétrie, curseur de droite, Bézier corner. À ce moment-là, vous pouvez prendre n'importe lequel et vous êtes en asymétrie. Vous gérez toujours les tensions, mais vous êtes asymétrique. Vous pouvez bien sûr rebasculer en mode corner pour récupérer la forme préalable. Ces petits cocktails euh, Bézier corner, Bézier smooth et corner sont assez intéressants. Nous allons passer à un exercice pour une meilleure application par la suite. Okay et nous allons utiliser parce ce qui est ici aussi qui peut être assez intéressant. Donc je vous invite donc à passer maintenant à l'exercice suivant pour les manipulations des points et de leurs tensions tangentes et segments. Pour faire notre exercice, je vais vous demander de vous mettre en vue frontale, l'agrandir, Alt-W. Créer 2D, Ligne. Nous allons nous mettre en accrochage à la grille. Bien vérifier, Shift, c'est-à-dire majuscule, bouton de droite, Grid Point. Je répète, Shift, bouton de droite, choisir, Grid Point. Bien. Et appuyer sur S. Automatiquement, vous allez avoir l'accrochage actif parce que vous avez appuyé sur S, qui signifie le snap, et vous, vous allez voir que ça s'accroche à la grille. Pour créer la ligne pour cet exercice, regardez bien, je crée et je vais faire tout simplement ceci. Je calcule dans ma tête les points qui m'intéressent. Autrement dit, 1, 2, je monte, 1, 2, 1, 2, je monte, etc. Donc c'est un exercice d'observation. Ben, Somme toute, très rapide puisqu'il devient quand même très mécanique. Ici, je vais changer un petit peu. Voilà. Et voici. Fermez la ligne, oui. Très bien. J'enlève l'accrochage avec S au clavier. Je retourne dans Modifier. Je vais sélectionner maintenant tous les points qui sont à l'intérieur. Je ne prends pas le point qui est ici je prends tous les points à l'intérieur de cet escalier curseur de droite, smooth et j'obtiens comme ça une régularité. curseur de droite, bézier. là j'ai toutes les poignées. le problème avec les poignées de bézier c'est que si j'en modifie une ça va se modifier aussi à l'extérieur. cela ne m'intéresse pas. curseur de droite, bézier corner. là c'est beaucoup plus intéressant. regardez bien, je vais basculer en mode move, W au clavier et je prends une poignée. pour l'instant il n'y a que lui qui bouge. CTRL Z pour rétablir. Si je coche l'option Lock, c'est-à-dire bloquer les poignées, toutes les poignées de ce côté-là vont être bloquées. Toutes les poignées qui sont du côté de l'ordre opposé à la création, dans ce cas-ci, donc l'ordre de création est important, de tous mes points sélectionnés seront bloqués. Toutes celles qui sont semblables. Si je fais All, à ce moment-là, toutes les poignées sont sélectionnées et non pas celles qui sont d'un côté, on peut dire gauche ou droite, relatifs par rapport à l'ordre de création. Je répète. Je vais remettre les points comme avant. Corner. Tous mes points sont sélectionnés. Je coche baiser corner. Non. Je coche smooth pour avoir un arrondi, puis je coche baiser corner je veux bloquer toutes les poignées lock handle qui sont du même côté. Je prends n'importe laquelle de ma sélection multiple, je tire et je creuse. Et j'obtiens comme ça rapidement voilà des dentitions pour ma scie. Oui en fait c'est ça que je voulais faire. Je reviens sur point. J'aimerais sélectionner par exemple euh, ce point. Alors, ce n'est pas toujours très évident, je vais débloquer ceci. Pour sélectionner ce point, ben, il faut simplement cliquer dessus. Bien. Bon, tous ces points ici ont une petite erreur, je vais donc les prendre et les mettre par exemple en smooth. Ah, très bien. Comme ça, je vois que j'ai tout lissé automatiquement. Je vais prendre ce point et je vais le descendre. Alors des fois, il n'est pas facile de pouvoir sélectionner des points. Vous avez ici segment end qui est très intéressant, il vous permet de choisir le point, non pas en cliquant directement sur le point, mais en sélectionnant le segment. Si vous êtes le plus proche d'un des points, en cliquant sur le segment, vous allez accéder au point le plus proche de votre clic sur le segment. Autrement dit, si je vais cliquer ici, je vais obtenir ce point. Si je clique un peu plus haut, au-delà de la moitié du segment, je vais prendre le point le plus proche. Segment End. Bien. On a d'autres modes de sélection, mais à voir vraiment leur utilité. Je continue maintenant pour une option qui est assez intéressante. C'est de continuer à créer une ligne. Je suis en mode sélection. Je vais dans la partie géométrie. Create line. 1, 2, 3. Et je fais simplement le plus basique possible. Close spline. Je désactive Create spline. Et je reviens tout simplement sur la gestion de mes points. Je sélectionne tous ces points-là, pas celui-ci, contrôle pour désactiver une sélection. Contrôle vous permet d'avoir une sélection multiple ou de désélectionner une sélection. Tous ces points, curseur de droite, smooth, Bézier. On peut comme ça facilement créer des cercles. Ou des formes qui pourraient m'intéresser, okay. pour créer un profil un peu plus judicieux. J'ai ici la sélection des points, la sélection des segments. On prendre un segment, le déplacer, changer sa rotation pour avoir une meilleure inclinaison. Les splines. Maintenant, on comprend un peu mieux. J'ai la forme extérieure que je peux agrandir ou d'autres formes, comme par exemple celle-ci, que je peux modifier son profil. Je peux tout à fait aussi dupliquer Shift, et je duplique les formes intérieures. Tout ce que je fais ici est en fait dans l'espace objet. Je suis à l'intérieur de l'espace objet, je suis en mode sous-objet. Il vous l'indique en étant surlumineux jaune. Et bien sûr, je peux quitter le mode sous-objet. Ici, j'ai mon plan 2D, Alt W pour voir sur toutes les vues, et voici en vue 3D. Voici une manipulation des points et dupliquer des formes. Pour comprendre un peu mieux, nous allons passer directement maintenant à la phase des modelings un peu plus complexes, qui vont nous apprendre à modifier des lignes et surtout à aller plus loin dans la modélisation. Allons un peu plus loin dans la création de lignes et de formes. Pour cette petite approche de la modélisation, alors on est bien ici dans la modélisation de base. En utilisant des lignes 2D, nous allons créer un rectangle non pas dans la vue perspective, mais dans la vue frontale. F au clavier, Alt W pour l'agrandir. Je crée un rectangle. Chose très intéressante maintenant, je désactive Star New Shape et je crée un second rectangle. Ces deux rectangles sont cumulés. Je peux toujours continuer à créer par exemple un cercle. Star New Shape est désactivé et je crée un cercle. Lorsque je vais dans Modifier, il n'est pas marqué rectangle 1, 2, 3, cercle, etc. Il garde le nom d'origine, rectangle, que je vais m'empresser d'ailleurs à changer en l'appelant forme de base. Voilà ma forme de base. Et cette forme n'est rien d'autre qu'un spline éditable, constitué de points, de segments et de formes le cercle, le rectangle et le rectangle premier. Quelle est la différence si je n'avais pas coché tout simplement Star New Shape bien Regardez bien, un rectangle, un autre rectangle et un cercle. A chaque création, si je vais dans Modifier, je reviens à la gestion du cercle, la gestion du rectangle et la gestion de l'autre rectangle. Je vais basculer en vue perspective pour une meilleure compréhension et je vais enlever la grille. Si j'observe, j'ai ici en fait trois formes différentes. Bon, ma première création, ma deuxième et ma troisième. Le fait d'avoir coché Star New Shape ou de le laisser actif, j'ai trois nouvelles formes ayant trois nouveaux espaces objets distincts. Alors que le fait de désactiver, lors de la création, j'ai une seule forme qui est considérée comme un spline contenant les trois formes. Mais tout ça est dans le même plan d'extrusion. Star New Shape nous permet donc d'avoir une forme combinée directement, ce qui est beaucoup plus aisé que de faire une autre manipulation. Je vous la montre quand même, mais je la trouve un peu plus complexe, ou disons moins pragmatique en termes de production. Je vais faire un rectangle, un autre rectangle et un cercle. J'ai sciemment oublié de cocher Star New Shape. Je prends mon premier rectangle et je vais dans Modifier. Pour l'instant, cette forme n'est rien d'autre qu'un rectangle. Si je veux la convertir en spline, c'est-à-dire en ligne éditable constituée de points, de segments ou autres, il faut que je la sélectionne, curseur de droite, convertir en editable spline. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, je vais la convertir en ligne éditable. À ce moment-là, je peux accéder à ces points, segments et à elle-même. Ceci dit, ça ne me dit pas comment je peux venir intégrer les autres dans son espace objet. Je dois aller dans la partie géométrie, attache. À ce moment-là, je fais 1 à 1. Ou si je fais attache multiple, je peux retrouver toutes mes formes compatibles dans la scène. Je ne vais pas prendre forme de base, mais je vais prendre les deux autres. D'où l'importance de toujours donner un nom à vos formes, sinon vous risquez de ne plus jamais vous y retrouver. Si j'utilise Attache Multiple, je vais retrouver donc ceci, une liste qui va me permettre d'aller chercher toutes les formes 2D. Voilà. J'enlève Attache et Attache Multiple, et tout ça maintenant fait partie du même espace objet. nous allons voir notre avec ce principe une modélisation de base et leur donner une épaisseur je vais supprimer cette forme et je vais garder celle-ci nous allons voir la création d'une épaisseur et surtout le principe de l'empilement quels modificateurs je peux ajouter à des lignes alors les modificateurs sont un peu comme des tas d'outils dans d'autres logiciels ou des effets Sauf qu'ici, il modifie ou il y rajoute un plus à ma forme. Ce qui est important à regarder, c'est l'ordre dans lequel j'ai créé ma forme. Ici, il vous montre les axes de la vue. Ne pas oublier de bien regarder les axes locaux. On remarque donc bien que les axes locaux sont différents. En effet, dans ma vue, surtout dans 3D Studio Max, X Y est toujours en bas et le Z est toujours vers le haut. Ça, c'est par rapport à la vue. C'est ce que nous voyons ici. A l'inverse, dans le cas de mon objet, le plan de travail, ici le plan d'extrusion contenant différentes formes, est dessiné en x et y, ce que l'on voit ici en axe local, et le z futur qui lui donnera une épaisseur sera donc sur les côtés ici. Ce que je vais donc faire, c'est donner une épaisseur à cette forme. Pour donner une épaisseur à cette forme, ça va me donner en fait tout à fait ce genre de choses. Désolé pour le dessin, voilà. Cette épaisseur que vous voyez ici et que l'on voit ici sera le Z local de ma forme. Pour donner cette extrusion, c'est Modificateur Mesh Editing Extrude. Alors, il y a différentes manières d'aller chercher les modificateurs. Soit vous les connaissez par cœur, exemple Extrude, qui donnera donc une épaisseur. Extrude donne donc une épaisseur, tout simplement. Ce sera par rapport au Z local de la géométrie. Cela se trouve dans les modificateurs, le menu déroulant qui est ici, Mesh Editing, Extrusion. Mais vous pouvez les trouver ici. Vous avez toute la liste des modificateurs. Pour ça, il faut les connaître par cœur. On a différentes séries. Vous pouvez simplement cliquer n'importe où. Attention, ici, vous positionnez et appuyez sur E. Et vous allez retrouver tous ceux qui commencent par E, dont Extrude. Voilà un peu le principe. Je vais, moi, choisir ici. Je vais sans arrêt travailler dans cette partie. Parce qu'en fait, ils sont séparés et pédagogiquement, je préfère utiliser cette zone. Modifier, Mesh Editing, Extrude. L'extrusion se fait automatiquement au-dessus. C'est ce qu'on appelle une pile des modificateurs. Vous pouvez désactiver en cliquant sur l'ampoule. Il est toujours présent mais inactif. Vous avez la valeur. Exprimé toujours en centimètres, à raison bien sûr d'avoir modifié l'unit setup. Le nombre de segments, 1, 2, 3, qui ne se voit pas si vous n'appuyez pas sur F4 pour voir le segment. Alors les segments sont tributaires forcément de la subdivision. En effet, si je reviens dans Editable Spline, j'ai l'interpolation. Si je la remets à 0, je reviens sur Extrude et je me rends compte ici que mon cercle n'a ben, plus de subdivision dans son segment. Je reviens sur Editable Spline et je rajoute les segments, les steps, les étapes à 6. Je reviens sur Extrude et j'observe ma subdivision. Il est quand même très laborieux à chaque fois de revenir et de remonter. Si vous voulez voir directement toute la pile, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de votre sélection, il suffit de cliquer sur l'éprouvette. Automatiquement, vous voyez comme ça, tout en étant dans une gestion inférieure, les effets de l'extrusion au-dessus. L'extrusion permet d'avoir tout simplement une épaisseur. Votre objet peut se comporter en maillage, en patch ou en herbs. Ne laissons-nous en maillage. Il peut y avoir une grille ouverte ou non de chaque côté de l'extrusion. Il peut l'interpréter différemment. Mais bon, on verra par la suite que vous ne peut-être pas bouger à ça pour le moment. Revenons un petit peu en dessous d'extrusion. Si Extrusion n'est pas affichée alors que vous êtes sur Editable Spline, vérifiez bien ceci. Est-ce que la pile est entièrement affichée Je reviens sur les points. Vous pouvez sans aucun souci déplacer les points en 2D et vérifier ce que ça donne. L'extrusion qui est enclenchée au-dessus s'affichera comme par magie. Vous pouvez déplacer les points modifier leurs paramètres à condition de ne jamais bouger sur un axe contraire au plan d'extrusion sinon vous allez au devant de pas mal de soucis en effet si vous bougez sur un axe autre que le plan d'extrusion vous déplacez et vous détruisez votre maillage et surtout vous allez obtenir un résultat peu heureux ctrl z faites donc très attention dans la manipulation des points, à ne pas les déplacer autre que par rapport au plan d'extrusion. Le plan d'extrusion, pour rappel, est dessiné ici. L'extrude donne une épaisseur. Vous ne pouvez travailler que sur ce plan ici. C'est-à-dire, vous pouvez travailler vos déplacements de points uniquement dans ce sens ou sur le plan. Je vous déconseille de déplacer le point dans le sens autre que par rapport à son plan. En effet, il ne pourra être déplacé que dans ce plan 2D. Tout simplement. Ces autres axes ne servent qu'à donner une épaisseur. On ne déplacera jamais les points natifs d'un plan d'extrusion sur les axes relatifs à l'épaisseur. En tout cas, au mieux éviter. Très bien. Si je sélectionne les segments, je peux bouger sans aucun problème le segment. Attention, toujours en 2D. On voit maintenant l'importance de pouvoir déplacer et de choisir avec les couleurs jaunes les plans 2D. Très bien. Le cercle est manipulable entièrement ainsi que la forme qui est ici. Si vous quittez, à un certain moment il y a une incompréhension car il y a une pénétration des plans de segments de base. Évitez soit qu'il est à l'intérieur, soit il est à l'extérieur, mais c'est une interprétation, il ne comprend pas. Vous pouvez sans aucun problème dupliquer pour obtenir comme ça tout ce que vous désirez. On pourrait donc, comme ça, dupliquer aussi en position ou dupliquer en échelle. Notre exercice est celui-ci. Donc, je vais annuler Reset. Voici votre exercice de base sur la vue frontale. Alt W. Je vais créer une forme 2D. Rectangulaire. Je vais désactiver Star New Shape, créer un autre rectangle et un cercle. Star New Shape est désactivé. Autrement dit, quand je vais dans Modifier, je retrouve Mesh Editable et ce euh, mixage, ce mélange entre le cercle et les deux autres rectangles sont devenus des points des segments. Ne pas oublier de redonner un nom plan. Sur cette forme Alt W, je vais basculer en vue perspective, Alt W pour l'agrandir. Sur cette forme de d qui est mon premier plan d'extrusion je vais lui ajouter un modificateur Mesh Editing Extrude. J'ai la valeur d'extrusion et j'ai ici ma forme. Je vais dans Editable Spline je clique sur l'éprouvette pour voir Extrude d'actif. Je peux prendre les points, mettez-vous dans le bon sens pour activer les points ou pouvoir les prendre facilement. J'enlève la grille qui m'énerve pour le moment. Je peux comme ça dupliquer les points, enfin les formes, en sélectionnant la forme, Move ou W au clavier, Shift et je déplace. Je peux changer l'échelle sur un seul axe. Déplacer mon objet, Shift, prendre les deux points qui sont là, je bascule en mode point, cliquer, CTRL, clic, mes deux points extrêmes sont sélectionnés et je descends. Je peux revenir dans Extrude pour modifier la distance. Voici un exercice relativement simple et rapide. Continuons notre aventure avec la création des lignes et de leur extrusion. Je vais créer une ligne dans la vue top. Je vais créer un rectangle. Je désactive Star New Shape. Je fais un cercle. Star New Shape est donc bien désactivé. Je crée un second cercle ici et un autre à cet endroit. Toutes ces formes sont sur le même plan d'extrusion. Si j'active la vue perspective et que je vais dans modifier, je retrouve Spline éditable. Je vais afficher en grand cette vue avec Alt W. Je vais enlever l'affichage de la grille en appuyant sur G. Bien. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est ce qu'on appelle une opération booléenne. L'opération booléenne va se faire sur les splines, c'est-à-dire les cercles et le carré. Explication. Dans la partie géométrie, je retrouve ici la possibilité de faire les opérations booléennes. Alors, les opérations booléennes, c'est simplement une union, une intersection ou une soustraction de deux formes entre elles. Je vais l'expliquer avec un dessin. En effet, si j'utilise la fonction booléenne par défaut, c'est une union. Si je prends le cas de deux cercles qui sont l'un dans l'autre, L'option Union va me créer une forme qui va unir les deux formes. Ce qui est dans la pénétration va être tout simplement supprimé. La soustraction va dépendre de l'ordre de sélection. En effet, si je sélectionne le premier cercle, c'est lui qui va survivre et l'autre va creuser dedans. Si je sélectionne le second cercle et que je clique sur Boolean, c'est le second qui va survivre. Et je vais avoir la cicatrice, si on veut, la coupe du premier. Dans le cas de l'intersection, ce n'est pas compliqué, c'est l'intersection qui va rester. Et j'obtiendrai donc ce type de forme. Nous allons voir maintenant comment cela fonctionne. Pour ce faire, vous devez sélectionner d'abord un spline, c'est-à-dire une des formes, cliquer sur Boolean. Ici, je suis en union, je clique sur le cercle. Je continue mon aventure en cliquant sur ce cercle et le suivant. Voici les opérations booléennes réussies. Je vais tout simplement maintenant mettre modification, mesh editing, extrude. J'ai comme ça eu une extrusion. Très bien. Alors, si je duplique cette forme, que se passe-t-il Si je duplique cette forme en copie, je retrouve l'extrusion et l'accès au spline. Il y a des choses très intéressantes. Comme par exemple Outline. Outline vous permet tout simplement quand le spline est sélectionné de mettre une valeur ici. Mais évitez ce système euh, car bon les valeurs on ne sait jamais trop exactement à combien elles sont. Mais pourquoi pas bien sûr. CTRL-Z. Moi je préfère cliquer sur Outline, l'outil Outline, cliquer dans la vue et avec la souris le faire personnellement, directement avec une certaine interactivité dans la vue. C'est un choix. Attention, ne refaites pas une hotline et encore une ligne et encore une ligne. Comme ça, vous allez cumuler les hotlines et il ne va pas comprendre ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais donc désélectionner et faire des CTRL Z pour annuler. Voilà. C'est un choix. Donc, soit vous cliquez sur hotline et vous le faites dans la vue, soit vous rentrez ici au clavier la valeur que vous désirez. Le fait d'avoir fait hotline, j'ai donc une double ligne. Si je reviens sur Extrude, j'obtiens quoi L'épaisseur. En effet, les deux profils sont différents. Ici, j'ai un profil avec un plein et un vide, tandis que ce profil est entièrement plein. Si j'augmente la valeur d'Extrude, je peux directement maintenant avoir les profils d'un mur et le sol. Voilà comme ça une manière très simple de créer des profils avec simplement des cercles et un carré. Mais on va continuer donc ici à créer avec des splines et des simples extrusions. Donc je vais activer la vue frontale, alt w pour être plein écran. Je vais créer un simple cercle. Voici je vais créer un rectangle. Attention, je ne désactive pas Star New Shape. Autrement dit, le rectangle que je vais créer sera donc bien un nouveau objet 2D. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Très bien. Curseur de droite et curseur de gauche pour tout désélectionner. Je vais choisir comme axe de référence avec PIC le cercle. Le cercle est maintenant reconnu comme axe de référence c'est la boîte qui va tourner par rapport au cercle. Je vais donc sélectionner la boîte, la fonction rotation par rapport au cercle et je choisis référent axe extérieur. La boîte tourne par rapport au cercle. Très bien. CTRL Z. Maintenant j'appuie sur SHIFT et je fais un double. Je vais en faire comme ça un certain nombre. Je vais tester au nombre de 10. Ok. Je me rends compte que j'aurais pu oups, voilà, en faire 10 de plus. C'est ce qu'on va faire donc maintenant. Voici. Et encore un autre pour la route. Très bien. Je peux comme ça repositionner correctement certains éléments. Bien. P de perspective. Et voici mes éléments 2D créés et distribués. Alors la manière de fonctionner, il y en a bien d'autres, mais pour l'instant on voit une manière simple par rapport aux outils que nous avons connus et, et utilisés jusqu'à maintenant. Cette forme de D, je vais la convertir en spline. Curseur de droite sur le cercle. Convert to editable spline. Je vais maintenant inclure tous ces carrés, enfin ces rectangles plutôt. Dans son profil, dans son plan 2D. Attache multiple, et je sélectionne tous les rectangles. Attache. Tout ça maintenant fait partie du même espace objet. Je vais basculer en mode spline, je sélectionne une spline, et je vais maintenant faire boolean union avec le cercle. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur tous les carrés tout simplement. Et je vais obtenir de cette manière un profil qui va me servir à faire une roue dentelée. Voilà. Pour faire le noyau de la roue, ce que j'ai oublié, je vais recréer un cercle. Attention, supprime. Dans la même vue, F frontal, je crée un cercle. Je vais placer ce cercle par rapport à lui. Quick Align. Automatiquement, il va se placer par rapport au premier cercle créé, c'est-à-dire pivot-to-pivot. Je sélectionne cette forme qui est un spline. Je vais dans Modifier. Je vais attacher ce cercle. Je reviens P perspective et je remarque maintenant que tout ça est dans le même plan d'extrusion. Modifier, Mesh Editing, Extrude. F3 au clavier pour voir le lissage. Et voici, très rapidement, une roue dentelée modélisée. Si je reviens sur Editable Spline, j'active l'éprouvette pour voir toute ma pile de modifications. Je peux sélectionner les lignes et modifier à loisir l'échelle ou dupliquer avec Shift l'échelle. Voilà une manière très rapide de modéliser des objets. Oui donc les booléennes peuvent être très intéressantes. Nous utilisons ici vraiment des systèmes euh, de base. Hein. Ça va excessivement vite avec simplement des splines et une extrusion. Alors les outils des Alors les outils vous permettent de personnaliser ou de modifier une ligne existante. Pour ça, on va d'abord créer une ligne. Je vais aller dans la vue frontale et créer une ligne de cette manière. Voilà. Je vais mettre ça en pleine vue, donc Alt W, enlever la grille. Voici ma ligne. Cette ligne, si je vais dans Modifier, est constituée de points, de segments, etc. Lorsque j'écarte les menus en cliquant ici et avec le pointeur de la souris qui change, je peux m'amuser à voir un peu tous les menus. Bon, évidemment, je pense que c'est un peu laborieux. Ce que je vais m'amuser à faire moi, c'est déjà réduire un petit peu ici, donc avec cette petite barre. Et bon, bah, je vais me dire que je n'ai pas besoin forcément des sélections. Je n'ai pas besoin de géométrie. Je n'ai pas besoin de surface propriété. Alors justement, le, le fait de toujours tout fermer comme ça. Vous pouvez le faire automatiquement en faisant un curseur de droite, Close All. Curseur de droite, OK. Je répète, curseur de droite, Close All. Ou bien vous pouvez en ouvrir un, curseur de droite, Open All. Curseur de droite, voilà. Donc on voit un peu le principe, et ça c'est pour tous les outils de Max, okay ça vous permet de filtrer, à condition de savoir à quoi, bien sûr, chaque tiroir sert. Cette section, tiroir, rendering, nous l'avons déjà vu auparavant. Interpolation aussi, c'est pour donc subdiviser les segments. Sélection. Sélection peut être intéressant si on a besoin, en termes de points, ceci. Mais pour le moment, pas trop. Show Vertex Number vous permet de voir les numéros des vertex. Alors qu'est-ce que les numéros des vertex ben, C'est tout simplement relatif à l'ordre de création. Le premier sommet créé est jaune et porte le numéro 1. Par la suite, par rapport à l'ordre de création, vous allez avoir une numérotation qui va se faire automatiquement. Ce qui vous permet de comprendre le sens de création de votre ligne. Si vous cochez Select Only, c'est uniquement lorsque vous allez créer un point que vous allez voir son numéro, bien, ou bien plusieurs sélectionnés, comme ça vous voyez les numéros du lot sélectionné. Je ferme le mode sélection. En effet, je peux sélectionner très facilement à cet endroit. Vertex, segment, spline, vertex. Si je vais dans la partie géométrie, je retrouve ici les parties les plus importantes. Create line, nous l'avons vu. Break permet tout simplement de prendre une ligne et de casser, enfin de prendre un sommet et de le casser. Qu'est-ce que j'entends par casser Je dirais plutôt le séparer. Curseur de droite move et je remarque que la ligne maintenant je l'ai coupée en deux. Ok. Attacher et attache, attache multiple permet de venir remettre d'autres lignes. Nous l'avons vu déjà avec les premiers exercices. Cross-section euh, n'est pas utilisé ici, ça nous permet, euh, bon, on ne va pas le voir de toute manière, peut-être par la suite, comme anecdotiquement, c'est pour faire les objets surfaciques. Pour rappel, ici, nous travaillons uniquement les objets polygonales. Refine permet de rajouter des segments, ou je dirais des points, mais par la suite, forcément, ils font des segments, sans modifier la courbe. Alors, ça, c'est pas mal, parce que voici ce point que je vais mettre en smooth. Si je fais Refine, je rajoute des points. Et je ne modifie pas comme ça à ma courbe. Weld permet de souder, mais vous avez aussi un Automatic Weld. L'Automatic Welding, si vous le cochez, tous les points qui sont dans une tolérance distance, ici la distance est de 15 cm, vont automatiquement se souder. Et à ce moment-là, ils vont faire partie de la courbe, et la courbe n'est plus coupée en deux. On a une autre technique de weld. Je vais donc faire un break pour ce point. L'autre technique de weld, il faut pour cela sélectionner deux points. Et si vous cochez sur weld, ils vont se souder. Ils ne se souderont qu'à partir du moment où les deux points sont dans la zone qui est ici mentionnée. Pour l'instant la zone est de 25 cm. Donc je ne pense pas que vu la taille, ce sera compris. Je vais faire une zone énorme et faire weld automatiquement ils se soudent. CTRL Z. J'ai une autre technique pour rapprocher les deux points, c'est fuse. Si vous faites fuse, les deux points sont rapprochés l'un à l'autre dans une position commune. Par contre, ils ne sont pas soudés. En effet, si je regarde, ils sont toujours distants l'un de l'autre. Je sélectionne les deux points, fuse. Maintenant, je peux faire weld, même avec une distance très petite. Ici, j'ai fait des CTRL Z pour continuer. Si je fais connect, je prends un point, je maintiens la pression de la souris et je vais vers un point ouvert pour obtenir un segment qui automatiquement va les connecter. Si je prends ce point maintenant, attention, je suis encore en connect, pardon, si je prends ce point et que je fais make first, voilà, ce point devient le premier. Si je prends ce point et que je fais make first, celui-ci vient le premier. Et ce qui me permet, lorsque je viens dans sélection, show vertex number, voilà, d'inverser l'ordre. Je vais désélectionner Select Only. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que l'ordre est inversé. Je reprends ce point, Make First. Et l'ordre de création est inversé. Ce qui est assez intéressant parce que vous allez voir que lorsqu'on va faire de, de la création avancée, l'ordre de la création de la ligne peut influencer énormément notre forme 3D. Je désactive Show Vertex Number, je n'en ai pas besoin pour le moment. Cycle me permet de sélectionner en voyageant sur la ligne par cycle, tout simplement. On peut euh, créer aussi d'autres points. Avec Insert, vous pouvez créer des points, mais modifier en même temps la position. Alors que Refine garde la position d'origine. On a Filet et Chanfrein. C'est très intéressant pour les points. En effet, observons ici, mon arrondi est inexistant. Je sélectionne le point, je clique sur Filet et j'augmente la valeur. Et j'ai comme ça un arrondi. Je vais prendre ce point, et je vais cliquer sur Chamfer, et je modifie. La différence entre les deux est relativement simple. Chamfer me sépare les points en segments de droite, filet me fait d'office un arrondi. Qui va nous permettre comme ça d'avoir de pouvoir faire deux trois petites choses ok et de personnaliser un peu mieux les courbes voyons maintenant les autres outils des splines euh, pour gérer un peu mieux les segments et ainsi que les splines alors voyons je vais créer tout simplement de la 2d en termes de texte je vais créer la lettre D majuscule. je vais la faire dans la vue top je vais agrandir cette vue alt w J'enlève la grille, G. Cette lettre, issue du processus de création texte, je vais la convertir en spline pour ce faire. Curseur de droite. Convert to editable spline, c'est-à-dire ligne éditable. Je peux comme ça aller chercher ces composants. Point, segment, spline. Voilà, là je trouve que j'ai beaucoup trop de points et je vais essayer de nettoyer tout ça. Alors, il y a plusieurs techniques. La technique, c'est de sélectionner les segments, euh, les points, et les supprimer tout simplement. Voici. Je peux reprendre ce point et revenir dans Filette pour changer de trois petites choses. Ok. Je vais reprendre ça, je supprime. Je reprends lui. Filet est toujours actif. Soit je le fais ici, soit je le fais directement dans la vue. Je peux maintenant sélectionner les segments. Voici deux segments sélectionnés. Et rediviser, divide une fois. Ou choisir le nombre de divisions. Bien. Je peux venir en mode spline et voir un petit peu les trois petites choses que nous n'avons pas encore vues. Boolean nous l'avons vu, mais mirror on ne l'a pas vu. Par défaut, le mirroring va se faire de cette manière. Si je clique sur mirror et je choisis les options, je prends le spline mirror. Le mirror se fait d'une manière horizontale. CTRL Z pour annuler. Mirror d'une manière verticale. Évidemment, c'est peu parlant. Et euh, autre, voilà. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est une copie de tout. Donc, une copie en Mirror, voici, et je déplace. Je vais maintenant modifier Mesh Editing Extrude. F3 pour voir, P pour mettre en mode perspective. Voilà les petits outils hein, qu'on retrouve pour euh, les splines. Alors pour faire le logo Dolby Digital ou autre, mais vous voyez que c'est pas très compliqué. En soi, c'est souvent du mirroring. Astuce de création spline, rappel. Pourquoi je vais faire ça Vous allez tout de suite comprendre. Je crée une ligne. Voilà. Je vais me mettre dans la vue frontale. J'active avec le curseur de droite. Alt W. Alors, je ne vais pas me mettre en accrochage. Je vais simplement créer librement. Donc, je vais enlever la grille. Créer des segments de droite, ce n'est pas toujours évident. Surtout si je veux ou j'aimerais bien, par exemple, qu'il soit euh, pile poil incliné à 90 degrés. Alors, en fait, il faut savoir que là, on voit vraiment les escaliers qui pixelisent. Autrement dit, ça signifie que l'angle n'est ben, pas correctement à 90 degrés. Et il y va de même pour cette partie. Alors, euh, pour créer plus rapidement des segments de droite bien orienté à 90 degrés. L'astuce est celle-ci. Regardez, je clique sur le mot ligne. Avant de créer, j'appuie sur Shift. Et là, je maintiens la, la touche Shift enfoncée, c'est-à-dire majuscule. Je clique, je bouge ma souris. Et de toute façon, je ne peux bouger. Ok. Que de toute façon à 90 degrés. Voilà. Hop, hop Voilà. Et comme ça, c'est très simple de créer des formes. qui sont parfaitement avec des angles droits. L'autre astuce, tant qu'à faire, ne pas oublier, j'appuie sur Shift, je crée, si vous êtes hors écran, vous appuyez sur I, I pour être en mode interactif et Z pour recadrer sur toute votre vue. Vous pouvez rappuyer sur Shift pour valider la projection en ligne droite. Voilà, c'est simple, mais bon, il faut quand même le savoir. Alors il y a d'autres types de splines. Créer, spline, nous avons vu les splines par défaut, les nerfs on ne les voit pas, et extended spline. Les splines étendues vont surtout aider les architectes. Je vais faire ça dans la vue frontale. Deux cercles concentriques. Un L. Une sorte de I ou de T pour faire les rails un t et une sorte de c. Tout le reste sont simplement des paramètres comme par exemple les arrondis qu'on va voir tout de suite alt w. Donc ici on voit bien que je viens de gérer les arrondis et on a comme ça chaque objet dans modifier différentes choses pour créer vos formes. Et là, encore une fois, je vous invite à essayer pour apprendre à apprendre. Voilà. J'enlève la grille. Et voici toutes mes formes. Je vais basculer en mode perspective. Je vais tourner autour. Toutes mes formes sont sélectionnées. Alors ceci, je vais l'utiliser justement pour voir aussi une manipulation, on va dire, euh, qui pourrait vous aider à la production. Je vais sauvegarder ça temporairement, Edit Hold. Je vais ajouter à ma sélection multiple un modificateur, Extrude. Je vais basculer en F3. Et ici, je vois que l'Extrude sur toutes mes formes est identique. Alors, ça, c'est pas mal du tout. Et on va regarder pourquoi il fonctionne de ce principe. Extrude, le mot, vous voyez, est incliné. Cela signifie que c'est instantisé. Si je prends cette forme, je peux le rendre unique. À ce moment-là, Extrude n'est plus instantisé. Je peux aussi prendre cette forme et modifier l'extrude. Ici, l'extrude est instantisé, donc on voit bien que toutes les formes suivent. Si je désinstantise, cette forme n'est plus instantisée. Si je sélectionne les autres et que je désinstantise, le mot extrude ne sera plus incliné, mais droit. Il va te demander, vous poser une question en disant Attention, si tu fais ça, chacun va avoir extrude unique. Bien. Pourquoi j'ai sauvé Edit, fetch pour restaurer ma sauvegarde rapide. J'ai ici donc différentes formes. Ok. Je vais maintenant sur une seule. Mettre Extrude. Modifier Mesh Editing Extrude. Voici. F3 pour voir le lissage. Le mot Extrude qui est ici, je glisse et je dépose sur la forme à côté. Bien vérifier que le pointeur change. Si c'est un petit plus, ça veut dire qu'il valide. J'ai dupliqué Extrude, tout simplement. Ce qui vous permet, lorsque vous avez une bonne taille d'extrusion, de voir la déposer à un autre objet. Si par contre vous voulez que votre modificateur soit instantisé, lors du glisser-déposer, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et à ce moment-là vous voyez que Extrude est incliné. Autrement dit, les Extrudes sont instantisés. Et là vous pouvez sans aucun souci les rendre uniques. Toujours suivant le même principe. Bien, maintenant que nous avons créé les objets 3D et 2D, je vais me permettre de revenir un peu sur le mode de sélection et les filtres. En effet, si j'avais fait ça au début, on n'aurait pas forcément tout compris. Donc, c'est une volonté de revenir maintenant sur la configuration ou les optimisations ou les sélections. En effet, lorsque je fais un objet 3D, puis par la suite un objet 2D. Je vais faire par exemple une étoile. Voici. Voilà. J'ai donc deux types d'objets totalement distincts. Si je fais H au clavier, j'ai ici des filtres. Si je désactive tous les filtres, tout simplement manuellement comme ça, je ne vois plus rien. Ceci permet de visualiser uniquement les formes 2D et celui-ci uniquement les formes 3D. Si les deux sont actifs. Je peux comme ça sélectionner automatiquement les deux. Lors de la sélection, vous remarquez que je sélectionne automatiquement les deux types d'objets. Imaginons pour quelque raison que ce soit, je veux sélectionner uniquement les 2D. Je ne veux pas sélectionner les 3D. Vous avez ici un filtre de sélection qui vous permet de prendre uniquement les formes 2D, shape. À ce moment-là, même si j'englobe la 3D, il n'y a que la 2D de sélectionner. Géométrie, il n'y a que la géométrie de sélectionner. On pourrait comme ça créer d'autres types d'objets. Exemple, je pourrais m'amuser à créer des lumières, des caméras ou autre. Je vais le faire, mais ça n'a pas grand intérêt ici. Je vais créer rapidement une lumière, mais sans aucun intérêt. Je ne m'occupe pas de ce qui met comme message et je crée une lumière, deux lumières, trois lumières, quatre lumières, cinq lumières. Ok. Lorsque je sélectionne, j'aimerais sélectionner uniquement maintenant que mes lumières ou non, non, plutôt la 3D et la 2D. Comment faire En effet, ici, je ne peux sélectionner que un à la fois, ainsi éventuellement que mes lumières. Mais je ne peux pas sélectionner une combinaison. Dans ce filtre de sélection, il est possible de créer soi-même sa propre combinaison. Exemple, géométrie, shape, addition. GS. Géométrie Shape Additionne. Ok. Maintenant, automatiquement, il se met en GS, Géométrie Shape. Même si je sélectionne les lumières, ce n'est que mes formes Shape 2D et Géométrie de sélectionner. Je retrouve bien sûr mes autres types de filtres. Je reviens sur Combo, com Composer soi-même, lui, et je le détruis. Voilà comment il est possible d'avoir une sélection multiple. Sachez aussi autre chose c'est que dans la partie créer, vous retrouvez les standards géométrie et tout ce que nous avons vu, ainsi que par exemple les formes 2D. Shape, Extended Shape, et voilà. Donc, vous voyez comme quoi il euh, y a beaucoup de redondances en 3D Studio Max, beaucoup de menus partout, mais généralement vous allez commencer à vous y retrouver facilement. Voici pour l'outil sélection et ses combinaisons de sélection. Nous venons de voir les sélections, les combinaisons de sélection et l'affichage. Mais l'affichage c'est pareil. En effet, si vous venez ici, vous avez un icône affichage. Vous pouvez cacher par catégorie. Shape, géométrie, light. Tout simplement. Et donc, euh, ça c'est assez intéressant pour dire bah, écoute, euh, les géométries je ne veux plus les voir, ou les chefs je ne veux plus les voir. Vous pouvez aussi cacher autrement, par nom, ou cacher ce qui n'est pas sélectionné. Hide by name. On retrouve comme ça la manière de filtrer. Je dirais tiens, je voudrais euh, bah, voir que, euh, que mes éclairages. Donc je sélectionne éclairage, et je peux ici inverser l'affichage. Si je sélectionne tout. Hide, tous mes éclairages sont cachés. Pourtant, on voit bien qu'ils sont toujours actifs dans ma vue. Un Eye-Hole permet de ne plus les cacher. On a pareil pour geler. Alors des fois, c'est un peu compliqué de voir ce genre de petites choses. Mais par contre, on a un petit outil très intéressant. Plutôt que de venir ici, Tools, Display Flutter. Le display flotteur est exactement la même chose que ceci, qui vous permet de geler ou de voir. High by category, shape, light, et on retrouve exactement le même principe. Inverse, je ne vois plus que les lumières, none. Voir et geler, pareil. Bien. Par contre, je vais sélectionner maintenant toutes mes lumières. H pour être en mode sélection et je veux voir toutes mes lumières. Je sélectionne toutes les lumières, OK. Et je vais les mettre beaucoup plus haut. Alors ça c'est aussi une petite astuce. Exemple, lorsque je fais Z, je zoome sur toute ma vue. Moi j'aimerais bien par exemple zoomer uniquement sur cette partie. Donc il serait bien que ces objets ne soient pas pris en compte dans mon zoom automatique, quel qu'il soit. À ce moment-là, vous sélectionnez les objets, et les objets sélectionnés, dans la partie Display, vous cochez Ignore Extents. Ils seront ignorés lorsque vous allez faire un Z, et je recadre comme ça automatiquement sur les objets qui m'intéressent. D'autres informations à l'affichage peuvent être intéressantes, comme par exemple la notion d'enfant-parent. Nous allons revenir à enfant parent de base, je vais faire une sphère, une autre sphère et une autre sphère. On va considérer malgré les proportions qui ne soient pas judicieuses que ce soit le soleil, la terre et la lune. Je vais faire enfant parent, je vais du petit donc dire de l'enfant vers la terre et la terre vers la lune. Bien. Je vérifie maintenant dans la vue perspective, j'enlève la grille. Je sélectionne mon objet et je bascule sur la touche E pour être en mode rotation. Je me rends compte que si je tourne le Soleil, la Terre tourne autour maintenant. Si je tourne la Terre, la Lune tourne autour. Très bien. On a donc comme ça bien son satellite qui est fixe. Si vous désirez casser la hiérarchie, il suffit de cliquer ici. À ce moment-là, la Terre n'est plus l'enfant du Soleil. Pour recréer, c'est très simple. Cliquez. Attendez que le curseur change de place, maintenez la pression sur la souris, et vous avez, comme ça, tout simplement, la hiérarchie qui vient d'être faite. Bien. Mais des fois, il est intéressant de voir la hiérarchie quand vous avez plein d'objets, mais qu'on ne sait plus exactement ce qu'on a fait. Dans le cas de la Terre et de la Lune, c'est relativement simple. Par contre, je vais faire exprès de mettre beaucoup d'objets. Voilà. Et je vais faire des hiérarchie. Lui va suivre lui, lui va suivre lui, lui l'enfant est de lui, l'enfant est de lui, et l'enfant va à celui-ci, et cet enfant-là est là. Bien malin maintenant, vu la vitesse que j'ai été, celui qui pourrait me dire, bah écoute, euh, euh, voilà, tu bouges lui, c'est l'ancêtre, mais alors la hiérarchie là-dedans, je ne m'y retrouve plus à part le fait de bouger les choses, et ce n'est pas toujours très évident. J'enlève la grille, je vais dans display. Link display tout en bas. Remarquez, plutôt que de tourner comme ça, vous avez toujours l'option close all avec le curseur de droite, link display. Si je prends un objet, display link, je vais faire pareil, display link, display link. Bon, je crois que le plus simple, c'est de faire CTRL A et de cocher tout simplement display link. Là maintenant, je vois les connexions. Qui va vers qui Bien sûr, c'est simplement des connexions d'informations. Mais là, c'est beaucoup plus intéressant pour voir les descendants enfants-parents. Vous pouvez remplacer pour éviter okay, que ce soit alourdi vos objets. Bien. Il n'y a pas de souci. Lorsque vous arrivez à les sélectionner, évidemment, vous les retrouvez. Lorsque je fais un rendu, tous mes objets sont là. CTRL A. Link remplace objet, je désactive. Le display link, par contre, est assez intéressant. Tout ça dans la partie affichage. Pour terminer avec ces fonctions avancées d'affichage et de sélection, vous pouvez sélectionner un objet et vous retrouvez aussi ici directement euh, Hide. Sélection. Un i all. Un uh, i all. Un i by name. Et là, on retrouve euh, par nom. Pour ça, il faut casser les objets. Donc, je vais sélectionner les tipotes qui ont tendance à être un peu plus rouges que les autres. I de sélection. Curseur de droite. Curseur de droite. Un i by name. Et je retrouve comme ça les tipotes. Un i. Je peux sélectionner les potes un peu plus vertes. Freeze Selection. Et à ce moment-là, les objets sont gelés. Unfreeze all. Le problème de geler, c'est qu'aussi il devient gris. Remarquez, vous pouvez sélectionner vos objets. Ici, je sélectionne les trois tipotes vertes. Pardon, curseur de droite, Object Propriété. Et je vais. Dans show frozen is gray, je désactive autrement dit, ils ne seront pas vus en gris lorsqu'ils seront gelés. OK. Je vérifie curseur de droite. Freeze sélection, ils sont bien gelés et ils ne sont pas gris. Bien, nous allons commencer maintenant notre euh, création avancée avec un Petit modificateur caché. Alors j'aime beaucoup ça, généralement on pourrait croire que tous les modificateurs sont ici. Mais non, certains modificateurs qui nous servent à modeler sont cachés ou ne sont même carrément pas affichés dans la liste. Nous allons commencer à travailler maintenant uniquement dans la vue perspective. Alt-W. Je vais créer une ligne cercle. Voici. Voici mon cercle. Dans la vue perspective maintenant, je vais appuyer sur L. L pour left. J'enlève la grille. Je vais créer une ligne. L'ordre de création de la ligne est important, c'est-à-dire du bas vers le haut. Je crée ma ligne de cette manière. Et j'arrête la création avec le bouton de droite. Je rebascule en vue perspective P au clavier. Je sélectionne le cercle. Et je vais demander que ce cercle ait comme profil cette ligne. Alors c'est assez amusant, mais vous allez voir ici un outil qui n'existe nulle part dans la liste des modificateurs ici. En effet, il faut aller la chercher dans Modifier. Et là on a une liste. Ça s'appelle Bevel Profile. Je clique sur Bevel Profile et je choisis le profil qui n'est rien d'autre que la ligne. Automatiquement, je vois ici la ligne qui s'adapte sur le cercle. Je vais déplacer la ligne et revenir un peu à ceci. Dans Bevel Profile, je trouve le gizmo. Alors qu'est-ce que le gizmo ben, Le gizmo, c'est pas compliqué. C'est en fait euh, ce qui est non définissable, le truc, le bazar, le machin. C'est en fait la ligne qui a servi à faire le profil. Si je bascule en mode filaire, on voit beaucoup mieux le gizmo. Vous pourrez remarquer que le gizmo s'est mis directement au centre de la sphère, euh, du, de cercle, pardon. Je peux le déplacer et j'influence comme ça le profil de la forme. Bien. Je vais rebasculer en mode lissage, toujours en appuyant sur F3. J'ai différentes options fermer au-dessus, fermer en dessous. Bien. Je vais m'occuper maintenant de ma ligne qui est ici. Je vais sélectionner la ligne qui est là et je vais modifier ses constituants points. La ligne qui est là est toujours instantisée avec le profil. Alors, ça, ça pourrait être assez intéressant parce que imaginons maintenant qu'avec ce simple système Bevel Profile, jusqu'où je pourrais aller. Bon, on va regarder un petit peu. Je vais sélectionner la ligne maintenant, le spline, et je vais cliquer sur Outline. Je vous invite donc maintenant à aller revoir toute notre petite approche euh, des splines. Outline, et je fais un double. Si je fais Outline maintenant, j'obtiens donc ceci. Tout simplement. Pour rappel, je vais prendre les vertex qui sont ici. Et je vais faire un filet pour obtenir un arrondi au-dessus. Je vais maintenant prendre le point qui est là. Je désactive le curseur de droite et je suis en mode Move. Et j'observe, tout en bougeant, le profil qui change. Évidemment, j'imagine que ceci est vraiment l'épaisseur à l'intérieur. Si j'appuie sur F3, je vois bien tout de suite mon épaisseur. Je peux rajouter un point avec refine et bouger ce point. Je gère comme ça l'épaisseur de ma poterie. Bien, c'est une technique rapide, c'est le bevel profile. petite astuce du Bevel Profile. Pour éviter certains soucis, nous allons revoir un peu notre profil. Je vous conseille de créer un segment à cet endroit avec Refine, un point en tout cas, pour avoir un segment à cet endroit. Et ce segment, il faut le supprimer, tout simplement. Donc je vais basculer sur segment et je le supprime. Les points, on va les aligner, tout simplement. Ce point, je vais demander qu'il soit en corner. Et celui-ci. Pareil. Bien. Il n'y a pas de souci sur le reste du profil. Par contre, que s'est-il passé du côté du bevel bien, Automatiquement, c'est soudé. Et je n'ai plus de renfon. Je peux regarder maintenant avec F3 ma forme et son profil gizmo. Et on voit où il vient se mettre. Voilà le principe du bevel profile. Vous pouvez bien sûr modifier le cercle pour obtenir hop, une variation de la forme. La ligne est toujours modifiable à souhait, à condition de bien respecter le plan 2D. C'est-à-dire qu'il est hors de question de travailler dans ce sens-là, sinon vous risquez d'avoir quelques soucis. Bien. Ben voilà une technique simple pour les Bevel Profile qui vous permet de déterminer comme ça même une épaisseur intérieure ou extérieure d'un objet de ce type. Je reviens un peu à ma ligne et à la théorie et aux astuces. Et si je vais dans l'interpolation je diminue les steps, je diminue donc la subdivision. Alors voici une technique assez intéressante qui revient un peu à bien utiliser le polygonal. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure technique, mais c'est une des astuces. Le step, c'est-à-dire les étapes, sont à 1. J'ai comme ça un minimum de forme. Si maintenant sur cet objet, j'ajoute une subdivision automatisée. Cette subdivision est dans la liste des modificateurs. Nous avons différents types de subdivisions. L'automatisé, c'est la TurboSmooth, le lissage automatique du maillage. En effet, si je lis, je lis bien Subdivision de surface. Autrement dit, c'est la surface qui va être subdivisée. Et je vais utiliser le TurboSmooth. ITération 1, c'est sa subdivision, une fois, deux fois, trois fois. Bien. Je vais basculer en F3 pour voir un peu mieux ce que ça donne. Je vais mettre l'itération 2 et je reviens sur ma ligne qui est à l'origine de cette subdivision. Steps 1, Steps 2, Steps 1. L'avantage de cette technique, c'est qu'avec trois points, vous pouvez modifier. Le profil d'un vase. Et vous obtenez comme ça directement toutes les courbures okay. au bec verseur ou autre. Et vous avez un contrôle total sur votre forme avec quelques points. En effet, c'est le lissage généré par le TurboSmooth qui génère la subdivision. Attention à l'itération, n'en mettez pas trop. D'ailleurs, je pourrais le mettre à un minimum de 0. Sauf au rendu, je vais la mettre à la valeur désirée, c'est-à-dire 2. Si je fais Shift-Q, je me rends compte qu'au rendu, j'ai une itération à 2 qui est supérieure à celle qui est affichée, qui est à 0. Le turbo smooth et donc un lissage automatique. Attention, je vais le remettre à 2 pour qu'on comprenne un peu mieux dans la vue. Ça part d'une théorie de 3 points. Pour avoir un arrondi, il vous faut un minimum de 3 points. Explication. Ici, j'ai 1, 2, 3 points. Autrement dit, je peux obtenir un arrondi. 3, je peux obtenir un arrondi. 1, 2, 3. 3, j'obtiens un arrondi, etc. etc., etc. Si je n'avais pas un minimum de 3 points, je n'aurais pas ce type d'arrondi à certains endroits. Il faut donc ce que l'on peut appeler une force ou une tension qui serait gérée par le point. C'est en fait ce point qui gère la tension et la courbure. 1, 2, 3. Si je supprime ce point, je vais subdiviser un peu moins. Là, on voit bien que la tension est limitée maintenant. Donc, moins j'ai de subdivision, plus ma tension est lissée. C'est le principe du turbo smooth. La courbe se fait de cette manière. Le point qui retient le lissage est positionné ici. Si je rajoute un tout petit peu, voilà ce que ça donne. Et si maintenant je fais un refine et que je rajoute un point 1, 3. Je vais bouger ce point maintenant et j'obtiens un arrondi. Tout à fait correct. On va donc comme ça personnaliser un peu mieux le pied. Refine, refine et bouger tout simplement. Avec une grande simplicité. Voilà notre petite première modélisation avancée, rapide, avec le bevel profile. Ok, ben nous voilà maintenant avec un vase. Ah, on est parti euh, comme ça dans la fougue de la création. Quelle est la taille de ce vase Là, je vais basculer dans la vue F frontale, tout simplement. Voilà. Et je vais utiliser un utilitaire. Créer 3D, 2D, lumière, assistant. Et ici, on a des assistants qui vont nous permettre de mesurer. Tape, Ils vont nous permettre de mesurer. Je clique et je monte. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est quand même pas mal. Parce que, euh, voilà, on est à un vase de 4 mètres de haut à peu près. Hein. Donc, on est à 397, 397 <laughs> cm de haut. Ça, c'est du vase. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais supprimer le tape pour réduire un objet. Je vous déconseille de faire scale. En effet, on peut avoir comme ça pas mal de soucis. Je vais réduire ce vase, et d'ailleurs, je vais réduire toute la scène. Alors, pour réduire toute la scène, je dirais que je vais réduire par 10, vu que par définition, euh, ben, ça fait quand même 4 mètres. Donc je vais mettre en mode perspective. Mon vase fait 4 mètres, c'est un peu violent. Vous avez ici des outils, des utilitaires. Créer, modifier, hiérarchie, animation, affichage, utilitaire. Dans utilitaire, vous avez toute une liste d'utilitaires. L'utilitaire relativement important, c'est le fait de pouvoir rechanger la taille de toute une scène ou simplement d'une sélection. Je vais dans mort, autre, et j'ai une liste ici de tas d'utilitaires. Les utilitaires sont donc par définition inclassables en termes de création, modifier, animation ou autre. J'ai ici World Scale, World Unit. World Scale, World Unit, donc modifier l'échelle et les unités de l'échelle de l'univers. Ok. Si je clique sur cette icône, j'ai soit de la scène, soit de la sélection. 1, bah c'est pour rester à l'échelle 1. Je voudrais ça 10 fois plus petit. Je mets donc 0,1. Je valide avec OK pour toute la scène. Ma scène est maintenant dix fois plus petite. Z et voici mon vase qui est beaucoup plus petit. Le fait de faire ça, tout a été rechangé. Nous allons vérifier L au clavier, Z L pour la vue left et Z pour recadrer. Je reviens sur la création tape. Je clique et je monte et je vois maintenant que mon objet fait 39 cm, il est donc bien 10 fois plus petit. Donc ça, c'est quand même assez important, P de perspective, pour pouvoir comme ça euh, avoir une scène à l'échelle. Généralement, il est quand même conseillé euh, de créer directement à la bonne taille, sinon vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Une fois que nous avons ça, nous allons euh, maintenant... Combiner et ressauver euh, différents éléments pour refaire ma scène, ou en tout cas une petite scène complète, en utilisant différents outils de modélisation que nous avons déjà vus. L'exercice qui va venir par la suite va donc comme ça euh, je veux dire, résumer pas mal de petites choses que nous avons vues ensemble. Bien, partons du principe que ce vase fait 40 cm de haut. Je vais supprimer d'abord ceci. Oups, CTRL Z. Okay. ah oui, je ne peux pas supprimer cette ligne parce que le bevel est toujours tributaire. Comment faire Alors voilà, justement, euh, avant de commencer à créer la scène, je me rends compte que le bevel est toujours tributaire de la ligne. Si je supprime la ligne, bah, le bevel disparaît. Alors c'est pas très compliqué, mais je vais vous conseiller un petit truc. Le turbo smooth, je vais euh, l'enlever. Curseur de droite. Cut. Pas delete, mais cut j'enlève le turbo smooth de la pile des modifications. Et cet objet, je vais le convertir en poly. Comme il est converti en poly, son historique de création, autrement dit sa dépendance à cette ligne, n'existe plus. Je supprime. Sur cet objet, curseur de droite, past, et je retrouve mon turbo smooth. Tout simplement. Donc les modificateurs, on peut les copier-coller. C'est relativement simple. Maintenant, cette petite astuce est en vue. Je vais sauver. File, save as. Je vais me mettre sur le bureau. OK. Et je vais l'appeler vase. Je bascule dans la vue left. Et je supprime le vase. Bien. Je vais créer maintenant de la 2D un rectangle. Je crée ce rectangle et je vais tout simplement dupliquer ce rectangle dans la vue left. Avec Shift, je duplique. En copie, 4 d'un côté et un de l'autre, par exemple. Je prends, je duplique vers le haut, en copie. Et je duplique vers le haut. En copie. Je crée un autre rectangle qui englobe tout. Très bien. Ce rectangle qui englobe tout, je vais convertir en spline éditable, c'est-à-dire en ligne éditable. Ce qui me permet de modifier, par exemple, sa taille, move, en bougeant ses points, de cette manière. J'aimerais bien attacher tous les autres petits rectangles dans son espace objet. Bon, que cela enchaîne. Je vais donc dans la partie géométrie, attache multiple et je les sélectionne tous tout simplement. Je bascule dans la vue perspective, modifier, mesh editing, extrude. Voici mon étagère. Cette étagère est sans fond, c'est un peu dommage. Je duplique ma forme en simple copie. Je reviens sur l'Editable Spline et je sélectionne tout simplement les splines intérieures. Tous les splines intérieurs sont, sont sélectionnés, je supprime au clavier. Donc l'extrusion n'aura plus les splines intérieures. Je réduis l'échelle et je repositionne tout simplement. Voici mon étagère avec un fond très rapide. Save as. Vase. Non. Meuble. Je peux maintenant venir importer de différentes manières, comme nous avons vu au début. Soit en glissant, déposant, soit en faisant merge. Bon, je vais choisir la technique merge. Import. Oh, Excusez-moi. Import, merge. Et là, je vais aller chercher tout simplement le fichier max portant le nom vase. Je prends le cercle. OK. Très bien. Oups, je me suis peut-être trompé sur l'échelle de l'étagère. Je sélectionne donc tous les composants de mon étagère. Utilitaire. Et je retrouve toujours ici Rescale World Unit. Si vous l'avez perdu, vous allez dans More. Et vous sélectionnez ici Rescale World Unit. Je change l'échelle uniquement de ma sélection. Je vais changer l'échelle, oh, il ne faut pas dire de 50%, mais de 0,7%. Ok, il n'y a que ma sélection qui a changé d'échelle. Je déplace légèrement le meuble, je prends le vase, je dépose. Bien. On a plusieurs techniques pour être sûr éventuellement que ce vase est bien posé. C'est les techniques des normales. Si je soulève ce vase, que j'arrive à aller en dessous, je vais pouvoir éventuellement sélectionner ces normales. Pour ce faire, mon vase est sélectionné. Je vais dans les outils d'alignement et je choisis cette icône qui va aligner par rapport au normal. Je prends la normale qui est sous le vase. Et je prends la normale qui est sur le meuble. Cancel. En effet, faites très attention, il faudrait peut-être pouvoir sélectionner correctement les parties du vase okay, et les normales correctement alignées. Je recommence, je prends la normale bien droite en dessous, bien au centre, je tourne avec Alt et bouton du milieu, et je clique sur la normale du meuble. OK, le vase est maintenant bien posé. Je duplique et je vais faire comme ça 4 copies. Voilà un peu un petit récapitulatif de 2-3 petites choses qui vont vous permettre de travailler facilement. Pour pouvoir sélectionner maintenant tous les vases parce qu'ils ne sont pas bien positionnés, curseur de droite, select similaire et je place comme ça uniquement les vases. Apparemment, il considère que mon meuble est similaire. Comme quoi, ce serait une science exacte. Alors, c'est un peu problématique, mais je ne sais pas comment faire. Mais ici, si, regardez bien, la sélection, je ne la fais pas rencontrante, mais englobante. À ce moment-là, je sélectionne les vases et je n'ai qu'à les bouger. Remarquez, j'aurais pu sélectionner aussi par couleur. Edit, Select by Color. Je clique sur cette couleur et automatiquement, que mes vases sont sélectionnés. Bien. On va donc maintenant prendre un vase et venir le repositionner à cet endroit. Lui va être plus grand que les autres. Rescale 2. Uniquement sélection. Il est deux fois plus grand. Évidemment, sa position a changé de place. Je réaligne la normale du bas, la normale du meuble. Tiens, cet endroit serait sympa. Hop, ok. Voici une technique rapide avec quelques petits rappels. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de créer des vases Bien sûr, des vases, des verres ou autres. Je vais sélectionner tous mes objets sauf le vase, grâce au fait que j'ai pris une sélection englobante, et je supprime Z au clavier pour revenir sur ma forme. Je vais observer cette forme vue de face, F donc, et Z pour recadrer. Et je vais observer. Je vais dessiner donc pour qu'on comprenne un peu mieux ma théorie. Théoriquement, ce vase a un axe de symétrie qui est au centre. Bien. Et nous avons un profil. Ce profil tourne par rapport à l'axe de symétrie. Cet objet a un, une épaisseur. Ben, nous l'avons vu, vu que nous l'avons créé tout à l'heure. Bien. Cet axe va se positionner où C'est là où c'est assez intéressant. En effet, lorsque vous avez un profil, le milieu de la forme, en effet, euh, ben, c'est au milieu. Alors ça a l'air stupide ce que je raconte, mais regardez bien. Voici ma ligne grossière qui serait par exemple le profil. Ben, le milieu, c'est au milieu. En effet, si ma forme a ce profil, où se situe son milieu Je vais dessiner le profil un peu sur le côté pour qu'on comprenne un peu mieux. Bien. Mon objet 2D va avoir une quadrature, c'est-à-dire le carré, l'espace-objet qui l'englobe. Cet espace-objet a tout simplement un milieu. Si je fais tourner l'objet par rapport à son milieu, je vais obtenir quelque chose d'un peu bizarre. Il serait intéressant qu'il tourne par rapport à au côté ou à l'autre côté. Oui, mais un côté ou un côté, euh, qu'est-ce que ça signifie Vous savez très bien que la gauche-droite, dans 3D Studio Max, ça n'existe pas. Autrement dit, ça va fonctionner par rapport à l'historique des points. Le point le plus minimum ou le plus maximum par rapport à l'ordre de création. Si je crée de cette manière, le point minimum serait ici. Car le point le plus éloigné de la première, du premier point de création, c'est lui. Ce serait le point maximum, ou plutôt celui-ci. À ce moment-là, je peux demander que cette ligne tourne par rapport à son minimum ou par rapport à son maximum. Et non pas, bien sûr, par rapport à son centre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Reset ne pas sauvegarder. Je vais ici créer une ligne dans la vue frontale. Je vais donc agrandir la vue Alt W. Pour les créations de lignes, hein, je vous invite donc au chapitre qui correspond à ça pour travailler rapidement. Comme on n'est pas encore forcément très à l'aise par rapport aux créations de lignes, je vais faire un truc très basique, uniquement en segment de droite. Je vous invite à faire exactement pareil. Bien. Et je vais continuer mon profil uniquement en segment de droite. Je ne fais pas d'outline, c'est voulu. Voici. Je vais sélectionner mes points. CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais les mettre tout simplement en smooth. Ces deux points-ci, je vais les mettre en corner. Voici, pour obtenir un segment de droite. J'enlève la grille. Pour revenir à ma théorie, j'ai ici le milieu de la forme. Ma forme est contenue dans un espace objet, et il y a une zone qui est à gauche ou à droite. Encore une fois, la notion de gauche-droite, une grande inconnue pour 3D Studio Max. On peut donc considérer que cette partie est peut-être son minimum, et celle-ci peut-être son maximum. Ce peut-être est tributaire du premier point créé et de l'ordre dans lequel vous allez évoluer vers le plus maximum opposé au premier point créé, tout simplement. Alors nous allons regarder ça. Le modificateur permettant de faire tourner un objet se trouve dans Modifier Patch Spline Late. En effet, dans Modifier. Patch, spline. Patch sont des objets surfaciques et spline sont des lignes. Editing, late. Lorsque vous mettez ce modificateur, vous avez le tour qui se fait automatiquement par rapport au centre. Il est possible d'aligner l'axe de rotation ailleurs que par rapport au centre. Pour ce faire, vous devez choisir les alignements minimum, centre ou maximum. Minimum, centre, maximum. Comme je vous ai dit, c'est vraiment compréhensible. Bien, je basculais en mode perspective, appuyez sur F3 pour voir mon objet. J'ai un petit souci avec les points communs. Ici. En effet, les points se répètent X fois. Combien de fois ces points se répètent? Ben, tout simplement par rapport au nombre de segments que vous voyez ici autour. La forme s'est dupliquée X fois sur un axe de rotation situé au minimum. Et le nombre de fois, c'est 16. Ce qui serait intéressant, c'est que le point commun se soude. Souder, c'est weld. Nous l'avons vu avec les splines. C'est exactement pareil ici. Si je coche weld, le point se soude et je n'ai plus cet artefact qui est dû à la redondance du point. Je peux rajouter des segments, mais n'oubliez pas votre capital face. Pour voir ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez appuyer sur 7 pour voir que simplement cet objet fait 21 000 polygones. On va peut-être se calmer un petit peu avec le nombre de tours. J'enlève l'affichage. Ici, c'est 7 au clavier. Et je vais enlever l'affichage des, des segments avec F4, qui permet de l'afficher et de l'enlever. Et je vais regarder autre chose. Le nombre de tours est de 360 degrés. Bah, pour rappel, c'est un tour complet. Si je réduis, ben je réduis le nombre de tours du profil, tout simplement. Mais on peut remarquer que ma forme n'est pas remplie. En effet, la ligne de départ ou la ligne d'arrivée, tout va dépendre du tour et de l'ordre du tour, est vide à différents endroits. Pour la remplir, il suffit simplement de cocher Cap Start ou Cap End. Et on peut comme ça, bien sûr, lorsque vous fermez, ça se soude automatiquement. Attention, les caps fonctionnent uniquement si dans la forme de base, je retourne sur ligne, vous avez un segment qui permet de fermer le profil. Je vous déconseille de laisser ce segment. En effet, normalement ma forme est complètement fermée. Je vais donc basculer en mode segment et supprimer au clavier supprime. Le segment. Si je reviens dans Late, j'ai beau cocher Cap, il va être impossible de fermer. Mais ceci dit, il est très rare d'avoir un vase comme ça, ou alors c'est pour offrir à quelqu'un que vous n'aimez pas. Je vais donc fermer complètement le vase. J'ai un petit souci, mon objet devient tout d'un coup noir. Ça, c'est une problématique qui est due à l'ordre de création ou à ce que vous faites. En effet, la lumière ne sait pas se mettre sur la surface. Oh oh, la lumière sur la surface. Est-ce que ce n'est pas le principe des orientations des normales Cela voudrait dire que mes normales sont inversées, c'est-à-dire que les normales sont à l'intérieur de l'objet. Moi, j'aimerais bien qu'elles se mettent vers l'extérieur. J'en ai parlé tout à l'heure, des normales vers l'extérieur. Ce qui voudrait dire que l'éclairage par défaut de 3D Studio Max va pouvoir éclairer la surface et mettre un joli petit impact lumineux. Sur les surfaces qui sont orientées vers l'extérieur. Pour orienter les faces vers l'extérieur ou vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une inversion des normales, flip normal. Ce n'est pas toujours le cas, des fois ça fonctionne. Voilà, flip normal, les surfaces sont inversées et on a le plus beau effet d'impact lumineux sur la surface. L'axe par défaut est orienté correctement. Vous pouvez bien sûr changer l'orientation de l'axe peut-être à éviter. Qui plus est, vous devez réaligner en minimum maintenant. L'axe est accessible aussi. Si vous cliquez ici sur le petit plus du late, vous pouvez accéder à l'axe. Si j'appuie sur F3, l'axe est symbolisé par une ligne jaune. Je vais diminuer le nombre de segments pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Voici l'axe symbolisé par une ligne jaune. Vous pouvez déplacer l'axe à loisir. Mais attention, à ce moment-là, l'alignement automatique n'a ben, plus de raison d'être, minimum. Cette technique est différente du bevel, tout simplement parce que si vous voulez descendre dans l'historique de création, c'est-à-dire ici ligne, vertex, je demande de tout voir, je peux modifier en temps réel directement le profil de mon vase. et en faire quelque chose d'autre. Carrément d'autre chose. En effet, ici, je me dis, bah, écoute, le vase, on va le modifier un petit peu. Ok, euh, Je vais changer son épaisseur, je vais changer sa courbe. Okay. Je vais changer ici. Euh, là, c'est une forme comme ceci. Voilà, je vais monter. Euh, ces points-ci ne m'intéressent plus justement, regardez bien comment j'ai fonctionné. au départ c'était un vase je vais prendre ce segment euh, je vais le supprimer oh, celui-ci aussi d'ailleurs je reprends ce point je le repositionne euh, un peu plus haut oh, d'ailleurs je supprimais d'ailleurs ce point encore ce point et je prends celui-ci voilà je vais changer sa courbe de Bézier. Je vais basculer en vue frontale, afficher la grille et regarder comme ça la que j'utilise. Je modifie ces deux points. Celui-ci. Celui-ci. Et je vais créer une ligne. Create Line. Dans le même espace objet, bien sûr. Simplement un triangle. J'arrête la création Create Line avec le curseur de droite. Je resélectionne ce point. Je trouverais ça beaucoup plus joli en smooth. Voilà. De mon vase, si je regarde maintenant l'opération, avec Late, j'ai un super verre à chimer. Oh, écoutez, on ne va pas se refaire. Le nombre de tours. Et voilà. Qui plus est, ce verre à chimer, si je regarde par transparence, il y a une petite bulle d'air en plein milieu. En effet, c'est dû à la ligne que j'ai créée. Je peux revenir en vertex, activer ou désactiver la pile pour pouvoir modifier un peu mieux ce galbe de verre achimé qui ressemble un peu trop à un calice. Un petit cognac Ou alors euh, une Grimbergen On peut comme ça s'amuser à s'imaginer différentes choses. À vous de jouer la 3D, c'est une manière de voir les choses. Et c'est bien avec l'outil LED que je vais vous le prouver. En vue frontale, Alt W pour être en pleine vue, je vais créer une ligne. Créer une ligne rapidement. Donc ici, je vais appuyer sur Shift pour n'avoir que des segments de droite. Voici. Voici. Alors je sais déjà ce que je vais faire. Voilà. Et je vais fermer la création. Close Pline. Le fait d'appuyer sur Shift, j'ai comme ça tous des segments de droite qui se propagent à 90 degrés. Bien, bien, bien. Je vais me mettre en mode perspective. J'enlève la grille. Je recule. Et sur cette ligne, modifier. Patch, spline editing, lathe. Minimum. F3. J'ai maintenant une arène où je peux mettre les, le spectacle au milieu. Voici. Si par contre je réduis la rotation de 360 degrés à 180 degrés, j'obtiens un amphithéâtre. Si je fais cap, cap, la fermeture se fait automatique. Attention. Soudure des points avec Wild. Très bien. Oh, et puis écoutez, d'une arène, je vais revenir à mon amphithéâtre, de l'amphithéâtre à l'arène, et puis ça ne m'intéresse pas. Je vais demander le nombre de segments limité à 4. Voici une esthétique un peu particulière pour une arène. Pour une arène, oui, mais pas pour ce qui va suivre. Je vais cliquer sur Axis et je déplace l'axe par rapport au profil existant. En effet, si je reviens sur mon profil, mon profil est ici. Si je reviens sur Late, je vais déplacer l'axe par rapport au profil existant. Mon profil est ici pour rappel. Et je vais déplacer l'axe par rapport au profil existant, c'est-à-dire sur X dans mon cas. Et je vais créer un cadre pour mettre une photo. Vous pourrez par la suite, bien sûr, revenir sur Ligne, afficher tout, modifier les vertex pour venir leur donner en smooth un arrondi pour obtenir un arrondi un peu plus judicieux au cadre. Voilà, et comme ça on peut rajouter des profils à mon cadre très simplement. Vous voyez, comme quoi c'est bien surtout la manière de voir les choses qui est importante. Et la 3D, le plus dur, c'est de se dire je vois une forme, comment je vais le faire Le let n'est donc pas forcément que pour faire des vases, des verres à chimé ou autre. Bien, maintenant que nous avons vu différentes choses comme le let, les lignes et ce genre de choses on peut s'aventurer maintenant vers le retour des objets 3D, les objets composés. En effet, ce sont des parties que nous avons oubliées. Mais ces objets composés, des fois, appellent les lignes, donc il était impossible de le voir auparavant. On peut créer des objets composés sans lignes, mais d'autres en ont besoin. Alors, je vais ici voir tout simplement les plus simples, aux plus compliqués, donc je ne vais pas forcément utiliser l'ordre. Oh, plus compliqué, c'est un grand mot. Attention, dans les objets composés, il existe des choses qui datent un petit peu d'un autre âge. Mais oui. En fait, il faut savoir que le morph que vous allez voir ici est un morph qui est franchement plus trop utilisé. En direz-vous, pourquoi alors est-ce que 3D Studio Max garde ce genre de choses On va le voir, ce n'est vraiment pas un souci. Mais le problème, il est là, c'est que des gens qui ont des anciennes bases de données doivent toujours pouvoir l'ouvrir. Donc, on verra sans aucun problème le morph, mais vous allez voir après dans Les avancées ou dans l'animation, qu'on a des systèmes d'interpolation beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches. J'ai cité le morpheur. On a comme ça d'autres choses comme Terrain qui était au départ un créateur de terrain, comme son nom l'indique, pour le jeu euh, qui ferait vraiment sourire beaucoup de gens maintenant. D'autres choses comme Connect qui peut être un, sympathique pour deux trois petits trucs, mais bon. Et on verra comme ça, désolé. Euh, des choses un peu obsolètes, mais on ne va pas trop s'y attarder. Inutile de vous dire que Boolean, c'est une opération 3D de fusion, est complètement obsolète par rapport à la nouvelle version ProBoolean. Soit, cette petite mise au point faite, on va quand même les voir, C'est pas un souci, mais pas en profondeur. Alors Max garde tout ça justement pour que, je vous dis, les personnes qui ont ces anciennes bases de données puissent toujours ouvrir leur scène. Ce qui fait de Max une impression d'usine à gaz. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses redondantes, et ça nous l'avons déjà vu. Je vais commencer justement par euh, le plus amusant, euh, qui est le morphe. Et on va voir ça. Pour ça, il faut créer des objets. Je vais créer par exemple une tipote et la convertir en objet polygonal. Curseur de droite, convert to editable poly. Je vais dupliquer cet objet. 3 fois. Je prends celui-ci, je déplace simplement son composant couvercle, je quitte le sous-objet élément. Je reviens sur celui-ci, je prends son composant élément et je déplace le bec-verseur et la hanse. Je prends celui-ci, je me refuse à faire un changement d'échelle non uniforme, j'aime pas ça. Je vais donc dans les composants, éléments, contrôle A, et je change l'échelle d'une manière non proportionnelle des composants. Ça a l'air amusant, mais en fait, il faut savoir que si vous modifiez les composants d'une manière non homothétique, vous ne risquez pas d'influencer l'espace objet en cas de liaison (enfant-parent). Bien. Alors voici donc euh, trois typodes qui ont bien souffert et une typode d'origine. Je vais montrer quelque chose qui est obsolète, mais bon, néanmoins, c'est présent. Créer. Objet composé. Morpher. Pick target. Je pique. Tout simplement. Voilà. Le morpher, en fait, ben, il aurait dû être en mode animé. Automatiquement, vous avez vu, il a créé une clé. Oups. CTRL Z donc. J'avance. Sur la ligne du temps, Pick Target, et automatiquement j'ai une animation qui se fait. Pick Target, et il va comme ça, automatiquement, faire des morphings des trois étapes. Et voilà, voilà, c'est tout. Oui, pour que cela fonctionne, il faut que l'objet soit tout simplement dupliqué. Et, et le même nombre de points. C'est un système d'interpolation. Lors de l'animation, il va déplacer dans l'espace objet que vous voyez qui s'adapte d'ailleurs. Dans l'espace objet, il va déplacer simplement les points constituant la géométrie. Si le nombre de points n'est pas le même, il est impossible et le, la cible target sera refusée. Je peux vous prouver en créant par exemple une simple sphère. Je vais prendre la boîte. Euh, la tipote, pardon, je reviens ici. Pick target, il m'est impossible de choisir la sphère. Je peux néanmoins reprendre un autre et changer comme ça l'ordre du morphing. Continuons dans notre foire à la brocante des objets composés de 3D Studio Max. Alors les objets composés de 3D Studio Max, je vais simplement voir maintenant le booléen de base. Il est vraiment à ne plus utiliser. Mais bon, je vous montre quand même. On ne sait jamais. Les booléens, pour rappel, ça va vous permettre d'unifier, de soustraire, okay, des objets. Alors le principe ici, c'est tout simplement dans deux objets. L'importance, c'est le premier sélectionné ou le second. Le premier sélectionné va porter la lettre A, le second B. Ces objets A et B sont des opérantes qui vont donner un résultat. En effet, c'est une opération booléenne, donc opérante A, opérante B. Si je fais une union, bah, ce n'est pas compliqué. Ces deux objets vont s'unir. Et l'objet B va disparaître. Il s'est fusionné à l'objet A et récupérer sa couleur. Si par contre je demande une soustraction, partant du fait que l'objet vert est toujours l'objet A, je vais obtenir ce genre de choses. Ben, je peux faire de A moins B ou de B moins A, bien sûr. Et si je fais une intersection, ben, c'est l'intérieur qui va être vivant. Et en fonction du premier sélectionné, ben, le survivant va garder la couleur, soit de l'opérante A ou de l'opérante B. Bon, sélectionnons donc l'objet vert et regardons ce qu'on peut faire. Objet composé boolean pic opérante B c'est-à-dire d'office le premier sélectionné est une boolean pic opérante B, et voilà. Mon dieu, que s'est-il passé ben, Les opérations sont ici. Comme je vous ai dit auparavant vous avez l'union l'intersection, la subtraction de B euh, de A B, la soustraction de B A, voire d'autres utilitaires pour couper. Si vous faites ctrl Z, vous avez de grandes chances que ça fonctionne. Refaire la subtraction ou l'union maintenant pic B, c'est une union. Si je bascule en mode filaire, je vois l'union. Par contre, c'est vraiment pas très, très 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 propre à la jonction. Et on peut faire que ce genre de choses. Intersection. Substraction de A moins B de B moins A. Cut. Cut ça permet de couper. On voit bien les segments qui sont coupés ici. Split, remove inside, remove outside. Ça permet comme ça de couper avec une forme. On obtient dans ce cas-là plus de forme 3D, mais une forme 2D. C'est un choix. Le problème de cette technique, c'est qu'elle n'est pas très 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 propre. Voilà pour ce qui est des booléens de base. Et on voit très bien les problèmes que l'on a dans la lumière. Okay, à différents endroits. On voit bien ici les erreurs que j'obtiens c'est vraiment pas très propre c'est pas la meilleure des techniques en effet boolean est à proscrire nous allons voir tout de suite après pro -Boolean. comme promis pro booléenne pro -Boolean est quand même une fonction un peu plus avancée je vais travailler directement dans la vue perspective alt w et supprimer la grille G au clavier Ici, je ne vais pas m'attarder à créer des choses compliquées, une boîte par exemple, et par exemple une autre boîte qui la pénètre, tout simplement. Bien. Pour observer comment cela fonctionne, je vais appuyer sur F4 au clavier pour voir les segments de mes objets. Je vais m'amuser à modifier le, le nombre de segments de la boîte, tout simplement, voilà, et voici. Ça n'a pas grande importance, simplement pour vous expliquer un peu le processus. Je prends la boîte la plus grande, je vais dans créer 3D objet composé. Pro boolean, star picking et je clique sur l'autre boîte. Automatiquement, je suis en subtraction. Je peux changer les opérations en sélectionnant la boîte numéro 2 en me mettant par exemple en union et en faisant changer opération. Lorsque je fais ça, ProBoolean optimise. Autrement dit, les segments que j'ai mis sur la boîte 2 disparaissent, tout simplement. Je répète. Si je redemande intersection maintenant, je prends la boîte 2 et je fais change-opération dans la liste. J'obtiens l'intersection. Si je fais Subtraction, change-opération, je soustrais. Je peux ici rajouter autant d'objets que je veux. En effet, si maintenant je reviens à créer des objets primitifs, par exemple, un cylindre, auto grid je le pénètre moyennement et je vais modifier son nombre de côtés. Bien. Je reviens sur l'opération booléenne star picking, je prends le cylindre. J'étais en mode soustraction. Je peux dire que mon cylindre sera lui en mode union. Change opération. Si je regarde le mode filaire, je me rends compte qu'il est bien en mode union. Ce type de boolean est beaucoup plus propre. Par contre, si je rajoute un turbo smooth que nous avons déjà vu auparavant, avec le bevel profile, qu'est-ce qui risque de se passer mais si on suit la théorie du turbo smooth, euh, je risque d'avoir de gros soucis. En effet, le turbo smooth a besoin de 3 points pour faire un arrondi correct. On pourrait considérer que dans cette zone, j'aurais donc un joli arrondi, puisque je vais avoir ceci. Euh, oui, mais j'ai toujours 3 points. Donc là, je vais avoir un arrondi comme ça. 1, 2, 3. Puis, ça fait toujours 3 points. Donc là, je vais avoir un arrondi de ce type. Puis là, 1, 2, 3. Je vais donc avoir un arrondi de ce type. 1, 2, 3 points, un arrondi comme ça. Bilan, il va me rester que cette zone complètement écrasée sur elle-même. Et je continue de plus belle en faisant comme ça. Et 1, 2, 3, en faisant de cette manière. Je vais obtenir donc un résultat un peu bizarre à cet endroit. Toute la forme va s'écraser sur elle-même. Vérifions. Modifier. Subdivision de surface. Turbo smooth. C'est exactement ce que je vous avais dessiné. Oups! Je mets le Turbo Smooth à la poubelle ou curseur de droite, Cut. Dans ProBoolean, vous avez un petit outil en plus. Je vais fermer tout, Close All. Advanced Options. Dans les options avancées, vous pouvez subdiviser, Make Quadrilatéral. Vous avez ici la taille. Plus vous augmentez, plus c'est grand. Le dessin se refait en fonction des changements d'angle et des coupures que vous avez eu lieu. On va donc maintenant réduire. Ne réduisez pas trop petit. En dessous de 2, vous risquez quand même d'avoir quelques problèmes. Bien. Et on remarque que la distribution des faces se fait par rapport à la forme que vous rencontrez. Carré, puis cercle. Si on peut appeler ça un cercle, lorsque c'est un cylindre. En tout cas, la forme ici est circulaire. Si maintenant je rajoute past, je mets en mode lissage, j'enlève le F4, je vois que le TurboSmooth fonctionne correctement. Étant donné le nombre de maillages, je n'ai plus cet écrasement qui était auparavant dû à l'optimisation complète du maillage. Ce qui est intéressant dans 3D Studio Max, je vais enlever le TurboSmooth, je vais enlever mes quadratiques, et je vais m'occuper simplement de Pro Boolean maintenant. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous allez dans ProBoolean et que vous choisissez dans les paramètres un objet box, box, cylindre, vous remarquez qu'il se trouve ici en dessous. Ce qui veut dire que si je clique sur cylindre, je peux toujours modifier la taille du cylindre, le nombre de segments ne sert à rien, ou sa hauteur. Ça c'est bien. Est-ce que je pourrais par exemple bouger Non, ici je suis dans l'entièreté de l'objet. Je reviens ici, boîte 2, je prends la boîte et je peux modifier sa taille ou sa profondeur. Est-ce que je peux la modifier Toujours pas. Je peux modifier que ses attributs qui sont dus à sa création. Par contre, regardez bien le côté de Proboulet avec le petit plus. Si je prends les opérantes, je peux choisir maintenant la boîte ici dans la piste, dans la liste pardon, et bouger la boîte tout simplement. Je pourrais prendre le cylindre et bouger le cylindre. Dans ce cas-ci, le cylindre, je vais le mettre en subtraction. Change opération. Et je peux voyager avec mon cylindre. Voilà, sans aucun souci. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus puissant que le boolean traditionnel. On va passer un petit exercice par la suite. Comme promis, un petit exercice de pro probooléen. Alors, on va faire une boîte, par exemple. Voici. Et on va bien regarder sur toutes les vues. Z pour recadrer ma boîte sur toutes les vues. Auto-grid. Je crée une autre boîte. Et là, vous pouvez remarquer que je suis rentré à l'intérieur. Move, je ressors légèrement. Box, encore une autre boîte. Et ici, je sors complètement. Je re-rentre un petit peu. Autrement dit, si j'observe, j'ai ici les boîtes qui rentrent progressivement. La plus petite rentre plus fortement à l'intérieur. Je vais sélectionner ces deux boîtes pénétrantes et je vais dupliquer deux fois. Voilà. Je vais maintenant sélectionner la plus grande des boîtes. Alt W pour agrandir. Je vais dans Objet composé, Boolean. Star picking. Je clique, je clique, je clique et je continue avec la plus petite des boîtes. Voilà. Le profil qui est fait tout simplement. Si je garde le mode filaire, il n'y a pas de souci et c'est relativement propre. Pour les modélisations d'architecture, ProBoolean est quand même très simple. On va regarder maintenant et ajouter autre chose sur une autre forme. Je vais faire un reset. Je vais créer un cylindre. Voilà. Je vais créer une forme 2D, un texte. Je mets mon nom, JYA. Je vais mettre changer de typo et changer la taille. Je vais donner une épaisseur à ce texte. Modifier, Mesh Editing, Extrude. Cette épaisseur, je regarde un petit peu dans les vues, je vais réduire et je vais monter. Ok. On a le choix. Je vais maintenant dupliquer la forme cylindrique en copie et changer son échelle. Changer sa hauteur et repénétrer à l'intérieur. Je sélectionne le plus grand des cylindres, créer, 3D, objet composé, probooléen, star picking, je prends, je prends. Oups! Nous allons vérifier ce qui se passe. Texte. CTRL Z, basculer en mode filaire, c'est normal, il ne rentrait pas à l'intérieur. Donc vérifiez bien toujours que le texte rentre bien à l'intérieur. Donc je prends mon texte, je descends dedans. Voilà. Je recommence. Dans mes boolean, star picking et je clique. Voilà mon texte et ma pièce est estampillée. Vous pouvez bien sûr rajouter des tas de petites choses. Alors ici nous allons voir maintenant euh, deux, trois petites choses. Je clique sur Opération booléenne, opérante, et je vais choisir par exemple le cylindre à l'extérieur. Le cylindre à l'extérieur, je vais rajouter des segments parce que je trouve ça un peu peu. Vous voyez Donc je peux rajouter comme ça des segments ou diminuer les segments. Voici. Je prends une autre opérante, comme par exemple le cylindre numéro 2. Lui, je peux rajouter des segments aussi, ou par contre diminuer les segments. Vous voyez Tout simplement. Le texte maintenant. Si je reviens sur texte, le fait d'avoir laissé texte, avec l'extrusion, je peux modifier le texte. et venir rajouter comme ça tout ce que je désire on va le faire plus petit voilà et je vais faire tout simplement trois fois double fait. cgi trainer voilà Point .com on va changer la taille en 50 cm Oups. On va donc remettre 40 cm. Hmm. 30 cm. Très bien. Oh bon, puis j'aurais préféré autrement. Opérant texte. Union. Change opération. Le texte maintenant sort, tout simplement. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas très compliqué, à mon sens. Le ProBoolean est très simple avec ce petit exercice de modélisation. Alors, dans les objets composés, on va retrouver par exemple le scatter, qui permet de distribuer un objet sur un autre. La première approche du scatter, c'est celui-ci. Je vais faire un torus, c'est-à-dire une bouée tout simplement. Et je vais faire un tout petit cylindre. Voici. Je vais réduire le radius ici. Et je vais modifier sa couleur pour qu'on puisse bien le voir. Le scatter, c'est de prendre un objet. Et après, par la suite, d'aller chercher l'objet sur lequel il va se distribuer. Je vais enlever la grille. Le petit objet cylindre est donc bien sélectionné. On le voit. Je vais dans Campan Object, Scatter, Pick, Objet de Distribution. Et je prends la bouée. Automatiquement, la bouée, le torus donc, euh, prend la couleur. Que se passe-t-il En fait, il ne faut pas croire que l'autre bouée a disparu. En effet, si je déplace mon objet composé, l'ancien est toujours en dessous. Vous pouvez le déplacer sans aucun problème. Je sélectionne mon objet et j'ai ici différents paramètres du scatter. Comme par exemple le nombre de duplications. Voici. L'échelle de base. 100% ou plus petite. C'est l'échelle de base de l'objet d'origine. Donc, du cylindre. Je peux rajouter des KO. Alors, le KO, euh, les vertex KO permettent de donner comme ça une irrégularité à la géométrie. Vous allez me dire quel est l'intérêt ben, Imaginez que ce soit des piquets qui sont dans un champ. Il est très intéressant de dupliquer comme ça tous des piquets dans un champ et avoir comme ça des formes un peu aléatoires euh, sur les piquets de bois. Alors, ça c'est l'offset, donc ici on ne va pas trop l'utiliser pour le moment, parce que mes objets ne sont pas animés. On peut en fait décaler les animations. Distribution Area par zone, toutes les X, Randomize, Along Edge, tous les vertex. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de mettre un numéro, vu que par définition il est désactivé. Et là, vous êtes tributaire de l'objet d'origine et de sa subdivision si je réduis la subdivision on voit bien que l'objet suit bien autrement dit lorsque l'on fait un objet composé ou oh, pardon lorsque l'objet fait un objet composé nous remarquons que l'objet de distribution était en instance si vous aviez coché référence, copie ou move, vous aurez tout simplement fait soit une référence déplacée ou une simple copie. Par défaut, il propose Instance qui permet d'aller chercher l'objet d'origine et de modifier comme ça ses constituants. Et donc forcément, lorsqu'on choisit une option comme par exemple tous les vertex, ben ça suit. Tous les edges au milieu, au centre des faces ou par rapport au volume. Par rapport au volume, c'est-à-dire que ça va se mettre dans l'espace objet. Je vais laisser Event de cette manière. On peut aussi faire tourner les objets d'une manière aléatoire pour les distribuer différemment. Sur différents axes, bien. Changer leur position aussi d'une manière aléatoire sur différents axes. Et c'est pareil comme ça pour différentes choses. Ceci dit, il suffit tout simplement de regarder. Vous pouvez sauvegarder des presets, c'est-à-dire des petites choses que vous avez faites, les sauver et venir les recharger. Des presets, c'est-à-dire des petits setups de personnalisation, comme nous venons de voir ici. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre le petit exercice. Je vais faire avec ça deux petits exercices. Je vais vous laisser travailler celui-ci et vous préparer à la prochaine vidéo des exercices. Passons avec un exercice maintenant qui va utiliser Scatter, en même temps le ProBoolean. Alors, on va commencer tout simplement en créant un cylindre. Ce cylindre, voilà, est assez petit. Je vais zoomer en appuyant sur Z. Créer maintenant un cône avec l'option AutoGrid. Je me place au-dessus du cylindre et je crée mon cône. Je descends légèrement le cône avec la fonction Move, curseur de droite, Move. Très important, je vais sélectionner d'abord le cylindre pour garder le point pivot et son origine, et faire une opération booléenne en utilisant les objets composés 3D. Pro booléenne, je bascule en mode union, star picking, et je choisis le cône. Cet objet ne fait plus qu'un. Si je regarde en mode filaire, la soudure est parfaite. Curseur de droite, convertir tout simplement mon objet en Editable Poly, objet polygonal. Je vais créer maintenant un objet 3D standard, un plan. Ce plan, je vais le subdiviser 30, tab, 30, valider avec Enter. Si je vérifie avec F3, je vois bien mon plan qui est subdivisé de 30 par 30 segments. Je vais enlever la grille G au clavier pour que ce soit un peu plus propre. Ce plan, je vais le convertir en objet polygonal. Très bien. Je sélectionne mon objet polygonal ici. Je vais modifier sa couleur pour le plus bel effet. Voici. Et je vais maintenant dans Créer, Objet composé, Scatter. On ne change pas, Pique Objet de distribution, et je sélectionne le plan. Je vais augmenter le nombre, Duplicate. Voilà, une trentaine. Je déplace cet objet composé sur le côté. Je vais modifier dans l'objet composé un paramètre assez amusant qui est Use Faces Only. Si je fais Use Select Faces Only, les objets vont se distribuer uniquement sur les faces sélectionnées. Il n'y a aucune face sélectionnée. Je prends mon objet poli, je bascule en mode polygone face, j'en prends une. Plusieurs. Beaucoup. Ben voilà ce que ça donne. Je vais choisir maintenant un mode de sélection un peu plus particulier. On a ici tous les modes de sélection. Je vais prendre simplement le vaporisateur qui va me permettre de choisir où je veux distribuer mes objets. Je quitte le mode sous-objet et je reviens sur Scatter. Je vais changer maintenant le nombre d'objets changer leur échelle. On a comme ça une forêt du plus bel effet. Un autre exercice de modélisation basique en utilisant les objets composés Scatter. On va créer une boîte, une sphère, avec pas trop de segments. Voilà. Je vais maintenant aller dans Objets composés, Scatter, Pick Object Distribution et je sélectionne la boîte. Par définition, la sphère se positionne sur la première face créée. De toute façon, je vais dupliquer son nombre avec l'option Duplicate. Voilà, par exemple. Je vais maintenant changer la taille de cette sphère dans Transform, Scaling. Je peux changer la taille en X, en Y ou en Z des différentes sphères. Bien. Je vais déplacer dans l'espace. Le skater. Voilà. Je vais convertir cet objet en poly. Maintenant, c'est lui que je convertis en poly. Je vais dans les composants éléments. Je sélectionne l'élément boîte et je supprime. Je quitte le sous-objet éléments. Je vais replacer maintenant mes sphères sur l'objet d'origine qui était une boîte. Je vais même glisser un petit peu dedans. Voilà. Maintenant, je sélectionne ma boîte. Et je vais dans Objet composé ProBoolean. Je vais utiliser Subtraction, Star Picking et je clique sur l'amas de sphère. J'obtiens maintenant une sorte de gruyère, tout simplement. On pourrait bien sûr subdiviser un peu mieux le gruyère et voir ce que ça donne. Là, vous connaissez le principe, c'est le fameux Turbo Smooth. Mais attention! Ne pas utiliser le turbo Smooth maintenant, parce que vous risquez tout simplement, vu le nombre de segments inexistants au-dessus, d'avoir un peu de surprise. Pour ce faire, petit rappel, il faut aller dans Advanced Option, activer Make, Quadrilatéral pour obtenir une subdivision. Maintenant, je peux rajouter subdivision de surface, turbo smooth. J'enlève l'affichage pour obtenir comme ça un aspect de gruyère. Bien. J'aurais pu éventuellement mettre le turbo smooth directement sur les sphères. Curseur de droite, regardez bien ce que je vais faire, cut. Je reviens sur les sphères, editable poly. Je suis donc bien ici sur les sphères, tout simplement, editable poly. Curseur de droite, past. Et là... Sur les sphères, je retrouve le turbosmooth. Le turbosmooth s'est mis sur les sphères. En fait, on peut comme ça ajouter, okay, tout simplement les éléments au-dessus de la pile. Et on voit comme ça quand je suis là, le turbosmooth n'est pas activé, le turbosmooth est activé et je suis sur Probléen. Et je peux rajouter en plus un autre turbosmooth. Bon, évitez quand même tout le temps de faire ça parce que je ne vous dis pas non plus euh, le nombre de polygones que vous allez obtenir. L'intérêt dans ce système, c'est pour vous montrer qu'il est très aisé avec Max de travailler dans son empilement. Voici un exercice avec le scatter et les subdivisions TurboSmooth qui sont mises dans les opérantes du ProBooléen. Passons maintenant à l'objet composé Connect. Pour utiliser Connect, vous avez besoin d'un objet polygonal ayant un trou. Alors, je vais enlever la grille. Je vais appuyer sur F4 pour mieux voir les segments de ma boîte. Voici. Je rajoute quelques segments simplement ici, à l'ordre de la création. Je vais créer un autre objet, par exemple une sphère. Je vais réduire le nombre de segments. Je vais placer cette sphère au-dessus de la boîte à une certaine distance. Ces deux objets, je vais les sélectionner et les convertir en commun en objet polygonal éditable. Le fait de faire ça, chaque objet est converti comme ça en polygone. Je bascule en sous-objet face, je supprime une face. Je vais supprimer une seconde face à cet endroit, par exemple. On voit qu'il y a une certaine distance entre les deux faces. Je quitte le mode sous-objet. Je prends la sphère qui est au-dessus et je vais supprimer une face aussi. Supprimer. Je tourne autour et je supprime une seconde face. Supprime. Je quitte le mode sous-objet. Dans ce cas-ci, on peut considérer que l'ordre de sélection importe peu. Je vais basculer maintenant en création 3D, campagne Object, Connect, Pic opérante. Automatiquement, l'autre objet est connecté. Dans ce cas, si je fais un déplacement, les objets sont combinés directement en type d'objet composé Connect. Je retourne dans Modifier. Et le fait d'être déplacé comme ça, c'est simplement move. On aurait pu faire des références, des copies ou des instances. On peut rajouter un certain nombre de segments dans la connexion et gérer sa tension. Très bien. Connect est toujours comme objet composé, composé forcément de ses opérantes, telle la boîte ou la sphère. Si je prends par exemple la sphère, on retrouve l'Editable Poly. La sphère est sélectionnable comme ça et on voit que les connexions essayent de s'adapter automatiquement. En fonction de la distance, il est des fois intéressant de venir corriger la tension et faire des tests de cette manière en rajoutant par exemple des segments. Voilà le principe de Connect. Attention, vous avez quand même une certaine tolérance. Pour éviter les croisements ainsi que l'objet lorsqu'il tourne il va automatiquement se reconnecter ok avec éventuellement d'autres points ou se croiser donc la rotation faire très attention vous voyez dans le mode de rotation que vous faites vous avez quand même une zone de tolérance bien si vous retournez dans l'objet poli vous pouvez sélectionner éventuellement une face et supprimer à nouveau, revenir dans l'opérante connect. Attention, ici je suis en sous-objet, je quitte, je reviens dans connect. Lorsque vous avez supprimé la face de l'opérante, la connexion a des fois un peu de mal étant donné qu'il faudrait avoir le même nombre de points. Je prends à ce moment-là la boîte, je reviens dans Editable Poly de la boîte, je sélectionne la face de la boîte et je supprime. À ce moment-là, automatiquement, je retrouve une connexion. Autrement dit, il est quand même préférable d'avoir le même nombre de trous pour pouvoir connecter, bien sûr, automatiquement. Je vais passer par la suite à un petit exemple concret. Petite application concernant le connect. Voici ici une scène contenant trois objets. Si j'appuie sur H, je vois la tête et les deux sphères. Ok. Je vais déplacer cette sphère. Ces objets sont déjà des objets polis. Je vais sélectionner les faces de l'objet poli, par exemple, et je vais demander de mieux les afficher en appuyant sur F4. Je vais sélectionner quelques faces et supprimer, par exemple, cette face-ci. Et puis, euh, tant qu'à faire, je vais supprimer, par exemple, euh, celle-ci. Voilà. Comme ça, j'ai, par exemple, deux faces de supprimer. Je pourrais cumuler un petit peu en faisant une face un peu plus grande, voilà celle-ci par exemple. Très bien. Je reviens maintenant sur le, le crâne, la tête du personnage. Lui aussi est un objet poli. Donc je vais supprimer les faces okay, qui m'intéressent. Par exemple, je veux dire qu'un nerfs un optique va être attaché là et l'autre, par exemple, serait attaché un peu plus bas. Voilà. Je quitte le mode sous-objet. Je rapproche l'œil de l'orbite. Et je vais maintenant sélectionner la tête, aller dans Objet composé, Connect, pic opérante, je prends l'œil. Et là, j'ai un message. Ce message n'existait pas auparavant. En effet, ici, mes deux objets ont des couleurs et celui-ci a une image qui est déposée dessus. Soit il cumule, soit il supprime. Bon, de toute façon, l'option la meilleure, c'est de garder respectivement chacun son propre matériau. Voilà. Alors je vais maintenant ici modifier les opérantes. Donc je retourne dans modifier les opérantes et je prends la sphère. Je place la sphère, voilà, au plus proche de l'orbite. Maintenant, si j'observe ici, je vais rajouter des segments et gérer la tension. Si je déplace la sphère, j'ai comme ça... Les nerfs optiques qui sont bien présents. Je vais replacer l'œil à l'intérieur de l'orbite et réduire un peu son échelle d'ailleurs. Voici. On va tourner et replacer. Bien, je vais enlever l'affichage du filaire en appuyant sur F4. Je vais plus ou moins changer les tensions, donc tout ça bien sûr est entièrement animable ainsi que le nombre de segments. On va animer tout simplement. Je me mets sur le frame 50 et je clique sur Autokey. Vous pouvez animer bien sûr les tensions et vous pouvez animer maintenant l'œil. OK. Voilà qui quitte l'orbite. Si je regarde maintenant, les tensions sont animées et l'œil voici, on va même diminuer un peu les segments. OK, et remodifier éventuellement les tensions. OK. Et on a comme ça l'œil qui se dégage du crâne tout simplement. Pour subdiviser maintenant notre géométrie, car nous avons travaillé avec une géométrie F4 basse résolution, on peut sans aucun problème rajouter en subdivision de surface le lissage Turbo Smooth que nous avons déjà vu. Je rappuie sur F4 et j'obtiens comme ça le lissage et les tensions qui se font automatiquement. Voilà une des applications de Connect. Bien, nous allons voir maintenant l'objet composé conforme. Alors, conforme, vous avez besoin pour ça de deux types d'objets. On va faire un test tout simplement avec une sphère. Voici la sphère et un plan. Voici le plan. Ce plan va être positionné devant la sphère par rapport à la scène de création qui était la vue frontale dans ce cas-ci. Je vais travailler dans la vue perspective. Je désactive la grille. Mon objet plan est sélectionné. Il est bien devant la sphère. Je vais dans l'objet composé, conforme, pick warp object et je choisis la sphère. Automatiquement, l'objet va essayer de s'appliquer. Alors maintenant, on va modifier deux trois petites choses comme le distance. La distance va permettre d'approcher oui ou non okay, la sphère. On peut rechanger les projections. Par exemple, on a comme ça un long vertex normal. C'est-à-dire qu'on va choisir la distance de projection par rapport au normal de l'objet. Et je vois ici la distance. On a comme ça par rapport au pivot, par rapport au centre de l'objet. OK au centre de chacun ou par rapport aux long vertex normal. Généralement pour ce type d'exercice, je préfère ça. Alors à quoi ça sert Eh bien en fait, ça sert généralement à placer par exemple une étiquette ou un objet qui suit la surface. Personnellement, je préfère pas trop ce forme mais un autre qu'on verra éventuellement par la suite. Alors je répète un peu la théorie. Les normales des objets. L'ormal de l'objet, c'est celui-ci en partant de la sphère, c'est-à-dire l'orientation des faces. Vous voyez que les normales influencent quand même beaucoup d'utilitaires. Comme les normales sont par rapport aux faces de la sphère, si vous utilisez un long vertex normal, l'objet plan est conforme au normal de la source qui était la sphère. Et donc, il va s'appliquer par rapport à la sphère. La distance qui est ici permet de donner une distance par rapport à l'objet source qui est maintenant copié. Tout simplement. Vous pouvez bien sûr sans problème convertir en poly, venir dans ses composants éléments, prendre la sphère et supprimer. À partir de là, vous avez tout simplement une étiquette que vous pouvez venir mettre à loisir sur la sphère d'origine. Voilà pour le principe de conforme, qui vous permettent comme ça d'avoir des faces conformes forcément à l'objet d'origine. Nous allons voir un petit exercice tout de suite par la suite. Pour cet exercice, je vais modéliser l'objet de base. Donc l'objet de référence qui sera donc une bouteille. Je vais dans la vue frontale et je vais créer tout simplement une bouteille très rapidement avec les techniques que nous avons vues. Voici ma bouteille, je vais dans modifier ligne, je prends la ligne et je vais utiliser outline directement dans la vue. Ce qui va déterminer l'épaisseur du verre. Je vais basculer en mode point et je vais demander par exemple que certains points soient tout simplement en mode smooth. Attention, lorsque vous faites ce genre de choses, vous risquez d'avoir des arrondis peu heureux. À ce moment-là, les points incriminés, c'est-à-dire ces deux-ci, on va par exemple les mettre en mode Bézier, qui va nous permettre de modifier la courbure des points. Ne pas oublier d'appuyer sur F8 pour pouvoir modifier okay, la courbure des points. Très bien. Si vous voulez modifier bien sûr plus de courbes, vous sélectionnez tous les points qui constituent cette courbe. Bézier corner. Et là, ça vous permet de choisir un des points et de corriger comme ça les courbes. Voilà, donc quand on ne sait pas trop, comme moi par exemple, d'où venaient les tensions, ben vous sélectionnez les points qui génèrent cette courbe et vous mettez en baisier ou en baisier corner. Comme je sais, pour rappel, que ce segment va être commun, je vais donc basculer en mode sous-objet segment et supprimer ce segment. Puisque je me souviens, lorsque je vais utiliser le, euh, le, le late ici, je vais demander que ces deux points se soudent automatiquement. Je regarde, et j'ai aussi le même souci à cet endroit concernant les sommets. Et je vais mettre, par exemple, Bézier Corner. Et là, je vais corriger la tension. OK. Diminuer ce point à l'intérieur. Descendre ce point et modifier. Je vais prendre ces deux sommets ici. Et dans ce cas-ci, je vais utiliser la fonction filette pour avoir un arrondi automatiquement au-dessus. Bien. Voilà. Je vais maintenant utiliser Modifier Patch Plane Late Minimum Weld pour souder les points communs. Vérifions si la bouteille vous semble toute noire. Flip Normal pour inverser le normal tout simplement. Ok, voici une bouteille du plus bel effet. J'enlève la grille et je vais créer maintenant l'étiquette. Créer 3D plan. Je crée l'étiquette ici, avec une certaine subdivision. Je vais réduire un peu sa taille et augmenter peut-être dans l'autre sens. Je vais placer l'étiquette devant l'objet, dans la vue frontale. Attention, pas à l'intérieur, donc je décale dans la vue dessus. Je vérifie bien dans la vue perspective s'il n'y a pas de souci. L'étiquette est sélectionnée, créer objet composé conforme pick warp objet. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner l'objet source, la bouteille. Très bien. Je déplace, je convertis en objet poli, je sélectionne l'élément qui est ici et je supprime. Je quitte le mode sous-objet et j'ai l'étiquette parfaitement alignée à la bouteille. Voilà un exercice on ne peut plus pratique okay. pour aligner un objet conforme à la surface d'un autre. Shape Merge, qui est situé ici, permet de découper une forme 3D avec un plan 2D ou de projeter les lignes d'un plan 2D sur une forme 3D. Bon, le plus simple, c'est de passer à l'action. Alors je vais tout simplement faire une boîte, par exemple, voilà comme ceci. Très bien. Je vais créer une forme 2D, une étoile. Je crée l'étoile au-dessus. Voici. Pour une meilleure lisibilité, je vais enlever la grille et je vais surélever légèrement l'étoile que je viens de créer. Très bien. Je sélectionne l'objet. Je vais dans création 3D, objet composé. C'est l'objet que j'ai sélectionné et je vais maintenant sur Shape Merge. Pick Shape, je clique. L'étoile est reconnue. Je désactive Pick Shape. Je peux sans aucun souci sélectionner l'étoile maintenant. Voici. Et la déplacer. Qu'est-ce que j'observe L'étoile est sur la boîte. En effet, si maintenant j'appuie sur F4 je me rends compte que la boîte a des segments qui correspondent à l'étoile. Je peux de cette manière convertir en poly, sélectionner la face étoile et éventuellement la supprimer. Alors depuis un certain temps, vous avez remarqué que je convertis en poly, puis je vais chercher le composant et je le supprime. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de faire ça automatiquement Je vais faire une nouvelle scène, partant toujours du même principe. Je fais une boîte, j'enlève la grille, je crée une 2D qui est une étoile, et je reviens au-dessus. Voilà. Pour une meilleure lisibilité, je soulève un peu l'étoile, et on voit bien ma scène. Ma boîte est sélectionnée. Je vais agrandir la scène tout simplement avec Alt W. Je vais basculer en mode filaire, F4 au clavier. Ma boîte est sélectionnée, je pars sur la création 3D, Campan Object, Shape Merge, Pick Shape et je prends l'étoile. Automatiquement, on voit que les segments sont sélectionnés. Alors, en fait, dans beaucoup d'objets composés, on avait l'option souvent des Cookie Cutter ou autre. Merge, ça veut dire que ça importe. Cookie Cutter, c'est pour découper. Automatiquement, c'est découper tout simplement. Alors, vous pouvez inverser et il ne vous restera plus que l'étoile. Ce qui est assez intéressant et à noter, c'est que tout ça est entièrement interactif. Je vais revenir sur euh, inverser pour obtenir ceci. Quand je dis interactif, c'est quoi Vous êtes dans 3D Studio Max, donc quand je vais dans Modifier, je retrouve mon empilement. Autrement dit, si je prends les opérantes Start, je retrouve ici la gestion de l'étoile. Je peux donc agrandir l'étoile, changer ces trucs intérieurs et voir le nombre de points. Très bien, voire même éventuellement une petite distorsion. Et forcément, toutes les fonctions suivent. Si je prends maintenant l'opérante boîte, je peux revenir sur la boîte et subdiviser la boîte à loisir. Ce qui peut paraître assez intéressant. En effet, lorsque je reviens sur Shape March, je fais un cookie cutter inversé. J'ai donc maintenant une étoile fortement subdivisée. Okay. qui est ici. Et ça, ça va être intéressant pour certaines choses ou certains types de modélisation. En effet, le cookie cutter va me permettre de cette manière de pouvoir, par exemple, modifier l'étoile. Vérifions. Je vais dupliquer avec Shift cet objet composé en simple copie. Cet objet composé, je reviens sur son opérante boîte et j'enlève la subdivision c'est-à-dire ce que j'avais à l'origine bien je vais cette étoile là supprimer elle ne m'intéresse plus pour mon exercice ou en tout cas mon exemple j'ai deux objets un objet qui est subdivisé en tant qu'objet composé grâce à la boîte que j'ai subdivisé dans ses opérantes et un objet que j'ai enlevé la subdivision de la boîte sur cet objet par exemple je vais rajouter un modificateur. Nous allons voir en détail euh, les modificateurs dans les suivants DVD, tous les modificateurs euh, qui peuvent vous aider à modeler ou à rajouter de trois petits effets. On a dans les modificateurs euh, paramétriques par exemple ici un bend qui sert à plier l'objet. Je vais utiliser simplement celui-là. Si je modifie l'angle, je vois mon objet qui se plie. Bien. Je peux changer sa direction voir ses axes. Lorsque je prends par exemple un axe Y que je plie, on voit ce que ça donne. Si je prends X ici ou Z, on voit un petit peu ce que ça peut donner. Je vais travailler la direction et je peux comme ça mon étoile la plier sans aucun problème. Mon étoile se plie correctement parce que tout simplement il y a de la subdivision. Si vous prenez le même modificateur que vous déposez sur l'objet, vous risquez d'avoir tous des artefacts sur la géométrie, parce qu'elle n'a pas de subdivision. Nous le voyons ici. Alors justement, on revient à la théorie du début. Qu'est-ce que nous voyons là ben Nous voyons tout simplement la triangulation qui s'est faite d'une manière aléatoire. En effet, il a essayé de trianguler lui-même la géométrie, c'est ce que nous voyons ici, et ce qui donne des résultats douteux alors que de l'autre côté c'est moi qui ai subdivisé la boîte tout simplement et qui décide de la subdivision de ma géométrie on pourrait voir les triangulations okay mais ça on verra après éventuellement dans les cartes graphiques la solution ben, c'est très simple c'est lorsque vous mettez des systèmes de déformation comme celui-ci pour éviter une triangulation automatique qui donne des aspects peureux peu vous retournez sur l'opérante boîte et vous rajoutez des segments. Des segments dans un sens et bien sûr les segments dans l'autre. Cette subdivision qui va aider forcément à avoir une modélisation correcte de votre forme. Voici une première approche du Shape Merge avec une petite fonction qui est en dessous. Mais en tout cas, le principe, c'est de bien comprendre les intérêts de l'empilement de 3D Studio Max. En plus de l'utilisation du shape merge. Petite application ou exemple du shape merge. Je suis dans la vue top et je viens de dessiner une ligne tout simplement. Je vais maintenant créer un plan. Je vais appuyer sur F4 pour voir la subdivision du plan et je sais déjà de ce que j'ai besoin, c'est-à-dire je vais subdiviser fortement ce plan. Je bascule. Dans la vue perspective, campan object, shape merge, pick shape et je clique. Je vais faire un cookie cutter inversé. Voici mon plan qui est tout simplement positionné. Avec différents outils, je peux par exemple le convertir en poly. Et maintenant modifier ces points ou l'intérieur de ces points ou autres avec ce qu'on appelle une sélection adoucie. La sélection adoucie réagit exactement du même principe que la sélection adoucie que nous avons vue auparavant pour les lignes. Et on peut simplement tirer ma forme de cette manière. Ce type d'outil, OK, avec le shape merge, me permet de faire ce type de forme. Voilà exactement le principe pour cet arrosoir okay, pour la coupe qui est ici au-dessus c'est le shape -merge qui a fait la partie de cet arrosoir Les autres types de modélisation vous les connaissez c'est en fait simplement un late un autre late ça c'est un autre type de forme que nous verrons par la suite avec les objets composés Voilà typiquement l'utilisation du shape -merge. Alors nous allons voir maintenant un, une autre application par la suite permettant de combiner plusieurs formes. Voici un exercice complet reprenant donc les fonctions Shape merge et surtout les Splines. Et on va voir un petit peu ça, on va créer. Donc je vais mettre dans la vue top, Alt W pour l'agrandir, et je vais créer une ligne. Je vais donc me mettre ici en création de ligne. Je maintiens la pression. Je bouge la souris et j'arrête la création de ligne avec le curseur de droite. Je vais dans Modifier. Je peux modifier éventuellement la position des points, curseur de droite, move, ou leur tangente, si celui-ci est en baissier. Je vais sélectionner la ligne. Et je vais tout simplement faire un mirror. Mais auparavant, je vais cocher l'option Copy, Mirror, et voici une copie. Avant de les déplacer, j'active Automatic Welding pour que les points qui seront automatiquement superposés se soudent. En effet, si je passe maintenant en sous-objet Vertex, c'est-à-dire Sommet, je peux remarquer que ces points sont soudés. Ils ne font plus qu'un. Je vais le mettre en lissage pour obtenir un arrondi correct. Et je vais faire pareil pour celui-ci. Je vais le corriger maintenant en mode Bézier, en tirant tout simplement. Si vous n'arrivez pas à tirer, n'oubliez pas le raccourci clavier. Ici, je dois tirer simplement sur X, donc F5 au clavier. Très bien. Je vais continuer ma création de forme 2D, un cercle. Je vais attacher ce cercle. Dans l'espace objet de ma première forme créée. Je retourne dans Modifier, puisque cette forme est sélectionnée. Et tout en haut, j'ai Attache il suffit de sélectionner le cercle. Voilà, maintenant tout ça est une seule forme 2D. Toujours dans la vue top, je vais créer maintenant un élément 3D, un plan. Je vais subdiviser ce plan. Je vais mettre par exemple 20, tab au clavier, 20. Et voici. Bon, je... ça me suffit de toute façon. Je vais basculer en vue perspective, P au clavier. Je recule avec CTRL, ALT, bouton du milieu. Je maintiens cette fois-ci plus que la touche ALT enfoncée, donc je relâche CTRL, bouton du milieu, je suis en mode rotation. Pour une meilleure lisibilité, je vais enlever la grille, G, et j'appuie sur F3 pour voir le lissage et reflet. Je descends le plan, tout simplement. Ce plan est sélectionné, créé, 3D, objet composé, Shape Merge, Peak Shape, et je prends la ligne du dessus. La ligne est bien inclue dans l'option Shape Merge, Cookie Cutter, Inverse. La forme importée est en instance, ce qui nous permet de faire ceci. Regardez bien, je vais... Me remettre dans une vue comme ceci. Je vais quitter le mode Pick Shape et je vais sélectionner cette forme. Comme elle est en instance, ça va me permettre de pouvoir la modifier. Donc, curseur de droite pour tout désactiver et je clique la forme 2D. Je vais la modifier. Je peux modifier ses composants, c'est-à-dire interpolation steps, c'est 6. Si je mets forcément à 0, il n'y a plus d'interpolation et le résultat est peu heureux. Je vais augmenter l'interpolation pour obtenir quelque chose un peu plus correct ou plus propre, je dirais. Je peux aussi accéder à ses composants, tels le cercle, et le déplacer. Voir changer son échelle. Le placer à cet endroit, celui-ci. Appuyer sur Shift et en faire un double. Très important les manipulations sur les axes. Maintenant, je vais prendre par exemple ces deux points-ci et j'aimerais bien changer leur échelle aussi. Curseur de droite, scale. Le souci, c'est que le, la transformation échelle se fait sur chaque point. Un point ne peut pas changer d'échelle. J'aimerais bien changer les échelles par rapport à cette sélection groupée, c'est-à-dire de cette manière. Je prends l'icône qui est ici en dessous. Le changement d'échelle se met donc sur la sélection groupée et je peux changer facilement l'échelle de cette manière. Move. OK. Ne pas oublier que si vous voulez changer par exemple les courbes de Bézier de ces deux points, je vais mettre par exemple en Bézier Corner. Pour changer les poignées, CTRL Z, de tous les points sélectionnés, vous cochez Lock Handle. À ce moment-là, vous pouvez changer les poignées. Attention, All, pour changer comme ça toutes les poignées. Bien, et ça fonctionne bien sûr pour tous les points. Cette option est active. Il n'y a vraiment pas de souci. Ok. Cette ligne, je n'en ai plus besoin pour le moment. Je vais donc la cacher. Hide, sélection. Curseur de droite, Hide, sélection. Il me reste donc ce plan. J'appuie sur F4 pour voir sa subdivision. Vous pouvez parfaire sa subdivision en cliquant sur les opérantes choisir le plan dans le menu des opérantes reprendre le plan dans la pile et subdiviser à loisir par rapport à la subdivision que vous désirez. Bien. N'oubliez pas que plus il y a de subdivision, bah plus c'est lourd forcément par définition, bah plus c'est propre aussi. C'est donc un compromis entre bah je veux dire, la qualité et le temps de rendu. Bien. Cet objet, vous pouvez maintenant, si vous en êtes satisfait, le convertir en poly ou garder une copie. Je vais donc garder une copie de sauvegarde, une simple copie, on ne sait jamais cacher cette copie et celui-ci le convertir en poly. Ce qui va me permettre de sélectionner certains points en sélection adoucie. Par défaut, les points sélectionnés sont les points de la découpe. On peut comme ça les descendre tout simplement. Lorsque je les descends, je me rends compte que la sélection adoucie est un peu trop forte ou en tout cas mal gérée. Vous voyez la couleur de la sélection adoucie. Vous pouvez changer comme ça son atténuation, voir son mode, pour rappel. C'est exactement pareil que ce qui est dans la sélection adoucie des lignes que nous avons vues auparavant. Voilà. Et je vais sélectionner par exemple un point ici et augmenter la sélection adoucie. On voit que ce point n'est pas bien centré, voilà, celui-là est un peu mieux. Et on peut gonfler comme ça certains éléments. Cette manière de travailler va vous permettre d'obtenir comme ça les formes que vous souhaitez. Il y a encore d'autres techniques, mais néanmoins on se rapproche très bien de la technique qui permet par exemple de faire ce genre de choses. Voilà le travail d'un étudiant avec différentes découpes. Bien, nous allons voir maintenant euh, des choses qui sont inutiles et même pas agréables. <laughs> C'est-à-dire, dans les objets composés, vous avez terrain. Alors, je vais vous montrer rapidement. Okay. On va créer, par exemple, un cercle. Okay. Encore un autre cercle. Et puis un autre cercle, etc., etc. Il faut que les formes aient le même nombre de points, sinon ça ne marchera pas terriblement. Euh, il est préférable, pour contrôler correctement ces formes, contrôle A, de les convertir toutes, par exemple, en ligne. Editable spline. Puis par la suite, il faut les poser, enfin les placer, pardon, l'une par rapport à l'autre, okay. en mode élévation. Très bien. Je vais enlever la grille, je vais prendre la forme de base, et je vais aller chercher l'objet composé, 3D, objet composé, terrain. picopérante opérante, et en fait il va créer une peau qui va rejoindre automatiquement l'un et puis l'autre. Bien, 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 bon on peut comme ça obtenir 2-3 petites choses euh, ici c'est surtout pour le maillage ok, une optimisation voilà, ou un dégradé de forme en forme bon soit ok, on va maintenant on peut rajouter aussi des options à voir un petit peu comment ça, ça va réagir et puis le fin du fin, et créer des couleurs par défaut pour obtenir une élévation et obtenir comme ça un merveilleux terrain. Bon, je n'ai rien dit, je ne suis pas responsable. On peut rajouter bien sûr une petite subdivision, donc on va mettre un turbo smooth, tant qu'à faire. Bien. Et on va par exemple prendre les cercles qui sont ici. On va prendre tous les cercles. Oups. Sélection englobante. Voilà, plus le cercle de base par exemple. Ah, je n'ai pas pris le cercle de base, désolé, donc je vais faire ceci. Voilà, je vais prendre les deux autres cercles qui sont là. Et je vais prendre celui-ci et je vais modifier ces points. Ouais. Donc euh, c'est quand même un peu bizarre. Il faut réinitialiser Ok, pour qu'il puisse comprendre un petit peu. Donc je retourne dans le terrain. Voilà, et adapté manuellement. Ok, bon, voilà, ça sert à faire des, des terrains. On va peut-être en rester là. Hein. Ne pas oublier que fut-il un temps, c'était assez intéressant pour faire les trois petites choses, mais là, je remonte à l'époque où Windows n'existait pas encore. Passons en revue maintenant l'objet Procuteur. Alors, l'objet composé Procuteur peut être comparé à un shape merge, mais enfin, on va voir ça un peu en détail. On va commencer tout simplement à collectionner les, les lignes qui vont couper l'objet, puis créer un objet. Alors ici, je vais créer par exemple un plan, dupliquer ce plan en trois fois par exemple. Je vais créer un objet qui sera coupé, et donc qui est pénétré par les trois plans. Voici mon objet, qui sera en toute logique coupé par les trois plans. Je vais enlever la grille, je sélectionne un des plans, je vais dans « Objets composés »,« Procutter »,« Pick cutter object », c'est-à-dire piquer les objets qui vont couper tout simplement l'objet qu'on choisira par la suite avec l'option « Pick stock object ». Avant de choisir cette option, vous avez directement différentes choses, c'est-à-dire des « Modes ». Auto-Extract Mesh, c'est-à-dire automatiquement les maillages vont et, et, et sortir de, de, du résultat, exploser par élément, garder en même temps à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors on va tout faire pour voir un petit peu ce que ça donne. Pick Stock Object, maintenant je clique simplement sur la taillère. Et bien voilà, désolé, mais c'est relativement simple. Je vais maintenant basculer en option Move. Voici les plans de coupe, que je n'ai plus besoin. Je supprime. Et voici mes objets qui ont été coupés. Mais qu'en fait, ce n'est pas très compliqué. La différence avec le Shape Merge, c'est que je ne coupe pas avec des lignes 2D, mais avec des plans. Alors justement, allons un peu plus loin. Je vais maintenant créer un texte. J Y A, donc j'y suis et je vais mettre une typo un peu plus grasse. Je vais créer ce texte dans la vue Top. Je vais lui donner une épaisseur. Mesh Editing Extrude. Lors de l'extrusion, vous pouvez désactiver Cap Start, Cap End, c'est-à-dire les couvercles. De ce fait, j'obtiens une forme 3D qui correspond tout à fait à un moule à découpe comme dans une pâte à gâteau. Je vais créer maintenant une boîte. Créer 3D Box. et positionner cette boîte au centre. Bien, je vais maintenant sélectionner mon texte, créer Objet composé, Procutter. Ici, d'office, le texte est reconnu comme Cutter Object. Je peux choisir encore toutes les options. Par contre, très important dans ce cas-ci, ma boîte n'est pas subdivisée. Donc je retourne dans Advanced Options, exactement pareil que le ProBoolean, et je demande que le résultat soit subdivisé en petites euh, faces. Bien. Je vais maintenant cliquer sur Pickstock Object et je clique la boîte. Et bien voilà. Move. Je enlève le plan de coupe et j'obtiens ma boîte. Les lettres ainsi que le plein et le vide de la lettre A et les autres lettres qui ont été découpées dans la boîte. Vous pouvez comme ça vous amuser à faire des petits bonhommes et couper la pâte à gâteau. Alors, ben, les petits bonhommes, on va le faire maintenant dans la vue top, toujours ce sera le plus simple pour moi. On va créer notre petit bonhomme, tel des enfants. Okay. Je désactive Star New Shape et je fais un cercle. Autrement dit, tout ceci est sur le même plan d'extrusion. Je reprends ma vue Perspective, Modifier, Mesh Editing, Extrude. Je désactive les couvercles en haut et en bas pour avoir mon moule de découpe tout simplement. Ben, je continue ma 3D. Je vais faire ma pâte à gâteau avec une boîte. Je monte un peu cette boîte de telle manière qu'elle soit pénétrée de part et d'autre, exactement comme un enfant qui enfoncerait euh, le, le moule à gâteau. Je sélectionne mon personnage. Je vais dans Objet composé, procuteur Automatiquement, ceci est reconnu comme une coupe. Alors, je ne pas oublier Advanced Option de cocher mes quadratiques, hein, okay, sinon vous risquez d'avoir pas mal de choses comme souci. Je coche les options pour garder toutes mes formes et je fais Pick Stock Object et je clique sur la plaque. Mais voilà, en fait euh, c'est pas très compliqué, je déplace mon moule gâteau et j'obtiens comme ça la pâte qu'on va jeter et le personnage qui est coupé. Voilà pour ce qui est du Procutter. Bien, avant d'attaquer toute la partie euh, sur le loft, la chose la plus intéressante dans le modeling de base pour les objets manufacturés et usinés, nous allons avoir une petite sensibilisation sur le mècheur. Alors, une sensibilisation parce que là, je vous reporterai plutôt sur des formations avancées ou les effets spéciaux, parce que le mècheur est particulier. Le mècheur s'est transformé en maillage un objet qui n'est pas un maillage. Exemple les particules ou des systèmes de fluides, etc. Lorsque vous créez un mesher, vous allez obtenir un icône et un objet euh, un peu farfelu à l'affichage, parce qu'il n'est strictement rien. Il va demander en fait de sélectionner un objet pour que celui-ci soit reconnu comme un maillage. Bien sûr, ici c'est une, une sensibilisation au concept. Que je crée un objet type particule système, des particules spray de base. C'est un exemple, c'est pour vous expliquer un peu le principe du mècheur, ce n'est pas une formation sur le mècheur. Si j'avance dans le temps, voici les particules. Les particules, je peux avoir différents types de formes ou de tailles. Ces formes sont vues généralement au rendu. Les voici. On pourra donc changer comme ça les tailles. Et faire comme ça différentes formes. Donc à chaque fois, je fais Shift Q pour le rendu. Bien. Si maintenant on voudrait avoir ça en tant que maillage, parce que on remarque que les particules réagissent en tant que taille, nombre, vitesse, variation et autres. Ici, ce sont des particules de base, bien sûr. C'est une initiation au mècheur. À ce moment-là, je sélectionne le mècheur. Et je vais chercher l'objet que je vais demander qui se transforme en maillage. Et voilà, maintenant les particules sont du maillage. C'est toujours instantisé, autrement dit, je peux changer la vitesse, okay, la variation et autres. L'avantage du mècheur, je vais maintenant cacher ce particule, je vais cacher la grille avec G au clavier. L'avantage du mècheur, c'est que ben, ces objets sont maintenant reconnus comme du maillage. Vous ne devez pas supprimer Meshur ni le convertir en poly parce que sinon l'animation dont il est tributaire ben, va être figée. Vous pouvez par contre ajouter tous les types de modificateurs propres aux objets polygonales. Comme par exemple Bent qui était un plié qu'on avait utilisé okay, pour la découverte euh, du shape -merge. Et là les particules sont tout simplement pliées et elles vont suivre la déformation qui théoriquement est faite. Pour un objet polygonal. Voilà à quoi sert le mesher. C'est un objet, c'est un système intermédiaire permettant à un objet non maillé d'avoir ses composants reconnus comme du maillage. On verra bien sûr plus loin une application euh, dans d'autres types de formations, des applications relatives aux effets spéciaux ou autres utilisant le mesher. Ici, c'était simplement une initiation qui vous permet d'être, euh, je veux dire, sensible à toutes les possibilités de 3D Studio Max. Bien, voyons maintenant l'objet composé loft, qui est à mon sens une des techniques de modélisation d'objets usinés, manufacturés, euh, les plus puissantes. Le loft a besoin de plusieurs choses. Il a besoin d'un profil, donc on va créer de la 2D. On va par exemple faire un cercle dans la vue de dessus. Lorsque je fais un cercle dans la vue de dessus, je me rends compte d'un petit ici sommet. Qui est en jaune. Pour rappel, cela signifie que c'est le sommet numéro 1, le point numéro 1. Par la suite, on ne sait pas trop si l'ordre de création va dans ce sens ou dans l'autre. En effet, 1, le 2 est-il là ou est-il ici Nous n'en savons pour l'instant rien grand chose. Je vais créer maintenant un rectangle. Voici. Mon rectangle est créé. Et je remarque que son premier point est situé à cet endroit. 1. Et là, on est face à la problématique identique où est le 2 Est-ce qu'il est dans ce sens-là ou là Généralement, si vous avez créé tout dans la même vue, tout va se créer dans le bon sens. Mais on verra bien. Pour rappel, le point numéro 1 de la sphère, enfin, du, du cercle, pardon, est à cet endroit. Bien. J'ai besoin maintenant d'une ligne d'extrusion. Vous pouvez le faire dans deux vues, soit frontale, soit left. Pour créer la ligne d'extrusion, ne pas oublier d'aller dans le sens d'extrusion. En effet, si mon plan, mes plans de base sont positionnés ici, si vous créez la ligne, premièrement, premier clic ici, puis par la suite vers le haut, deuxième clic, la forme va s'élever par rapport au sens de création. Lorsque je vais créer la ligne, j'appuie sur Shift, je clique et j'ai forcément une ligne droite. Je clique une deuxième fois pour valider et j'ai ici une invite à continuer ma ligne. Je n'en veux pas, curseur de droite. Je vais maintenant cliquer sur la vue perspective avec le bouton de droite et faire Alt W. J'enlève la grille avec G et j'appuie sur Z pour recadrer sur toutes mes vues. Pas mes objets, pardon. Et voici. Voici le contenu de ma scène. J'ai trois objets. En effet, j'ai mon premier cercle qui est ici avec son point qui est là, le point numéro 1. J'ai mon carré avec son point numéro 1 qui est ici. Et j'ai ma ligne d'extrusion. Je conseille de toujours sélectionner, très important, avant de commencer le loft, le chemin. En effet, ceci sera le chemin. Pour rappel, le chemin en anglais path. Quelle merveilleuse écriture. OK. Et les formes ici seront les profils. OK. Les profils, c'est-à-dire le cercle et le carré seront les profils ce seront des formes shape pour rappel donc sélectionnez toujours d'abord le chemin avant d'aller dans la création d'objets composés loft vu que celui ci est considéré comme chemin je dois faire simplement get shape si je vais chercher le carré je vais obtenir une forme avec une base carrée si je vais chercher le cercle, je vais obtenir une forme avec une base circulaire. Lorsque vous cliquez sur Get Shape, faites très attention au pointeur de la souris qui va se mettre à changer. Ce n'est pas la peine de cliquer à l'intérieur, vous devez cliquer sur les bords des formes. Pourquoi mon rectangle se met à la base du chemin et non pas à un autre endroit C'est relativement simple, vous êtes tout simplement à 0% du chemin. Pour rappel, mon chemin est ici au milieu et j'ai créé en élévation. Ici, nous sommes à 100% du chemin. Et forcément, ici, je suis à 0% du chemin. La valeur qui est ici utilise le pourcentage du chemin. Alors, me direz-vous, si maintenant je mets 50% du chemin, je valide avec Enter et je fais Get Shape. Si vous prenez un cercle, vous allez avoir automatiquement le cercle qui se positionne à 50% du chemin. En effet, 50% et je suis bien ici à 50% par rapport à l'élévation du chemin qui a été créé auparavant. Par contre, j'ai une torsade. À quoi cela est dû Alors je vais dégager cette forme qui est mon loft et je retrouve comme ça mes formes de départ. Alors c'est dû à quoi C'est simple. C'est dû tout simplement au premier point. Pour rappel, et j'avais insisté, le premier point se trouve ici, le second se trouve là. C'est-à-dire le second premier point de la forme. Autrement dit, le point qui est ici va essayer de rejoindre... Les points constituant la sphère, euh, le cercle, pardon. Si les points avaient été au milieu sur le carré, ça aurait été un vrai bonheur. Bien sûr, c'est un carré. Donc, les points se trouvent ici. Alors que le cercle, pour rappel, ils étaient ici. Donc, lors de l'élévation, les points vont essayer de rejoindre les autres points correspondants, et ce, par rapport au numéro 1 respectif, et dans le sens de création, pour aller chercher par la suite le 2, le 3, le 4, le 2, le 3, le 4. Il est donc très important maintenant de créer correctement la ligne. On a plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'est d'aller dans les composants même de mon objet Loft, modifier Loft Shape. En effet, pour rappel, le Loft est constitué de Shape et de son chemin. Si vous cliquez sur Shape, il devient en surluminant jaune comme tous les sous-objets et vous pouvez aller chercher les formes qui ont été, comment je veux dire, inclus dans la création Loft. Le cercle était mis à 50% pour rappel. Shape, je peux simplement sélectionner lorsque je suis en sous-objet le cercle. Et il vous dit bah, le cercle est mis à 50%. Vous pouvez le bouger et vous voyez les pourcentages qui évoluent. Vous pouvez replacer au clavier à 50%. Vous pouvez tout à fait maintenant basculer en mode rotation avec le bouton droit de la souris ou simplement E au clavier. A vous de tourner maintenant, et pour pouvoir placer correctement les points qui correspondent à l'élévation. En effet, dans ce cas-ci, les points qui sont ici au coin, le fait d'avoir tourné ma forme, celui-ci vient se placer à cet endroit, et donc l'élévation est un peu plus correcte comme aspect. Vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. Tant que vous êtes en sous-objet Shape, voici la magie de 3D Studio Max. Vous pouvez changer l'échelle, vous pouvez le placer, mais vous vous souvenez, est-ce que je peux le dupliquer Bien sûr. Si vous appuyez sur Shift et que vous déplacez, vous avez un menu qui va vous demander si chaque cercle déplacé sera en instance. Si vous choisissez l'option instance, le cercle qui est ici sera instantisé avec celui-ci. Si vous choisissez l'option Copie, ils seront chacun autonomes. D'ailleurs, c'est cette option que je vais choisir Copie. Maintenant, je peux changer son échelle et faire un peu ce que je veux. Continuons avec les carrés. Je vais dupliquer vers le haut en Copie. Je peux comme ça le replacer où je veux. Je vais le mettre tout en haut en Copie. Je vais redescendre en copie. Je vais prendre ce cercle-là, je vais changer son échelle. Je vais redescendre en copie et changer son échelle. Je peux changer son échelle d'une manière proportionnelle ou non proportionnelle, c'est-à-dire homothétique ou non homothétique, voire même rechanger sa rotation. S'il y a un souci, supprime au clavier. Voici une approche du loft. Comme promis, le secret du loft, après une petite découverte de quelques minutes qui vous montre quand même la puissance de cette technique de modélisation, alors cette technique de modélisation est surtout utilisée pour les objets usinés, manufacturés, etc. Et elle propose vraiment un maillage bien contrôlé et propre. À l'inverse de certaines choses un peu douteuses. En effet, euh, Procutter, Probooléen, Merge, bon, c'est bien, ok, mais, mais le maillage n'est pas toujours très propre. Ici, nous allons voir qu'on peut vraiment gérer tout. Alors, pour rappel, je vais travailler dans la vue top pour le moment pour créer simplement un cercle. Ce cercle, nous voyons son premier point en jaune. Je vais le convertir, curseur de droite, convert to editable spline. Et je vais observer les trois petites choses. Je vais agrandir la vue top plein écran, Alt W. Lorsque je bascule en sous-objet vertex, sommet, je vois ici le premier point. Pour rappel, j'aimerais bien que celui-ci soit le premier maintenant. Ça n'a aucun intérêt pour ce qui va suivre, mais néanmoins, c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez modifier l'ordre des points. Je vais dans la partie géométrie et je coche Make First bilan, bah, tout simplement, le premier c'est lui. Si je retourne dans la zone sélection, je peux demander de voir les numérotations des vertex. 1, 2, 3, 4. Pour rappel, cet ordre est aussi important lorsque vous créez par exemple votre forme vous-même. Vous, vous seriez donc obligé de créer le premier point dans ce sens-là et l'autre dans le sens suivant. Si jamais vous voulez créer un autre profil, ben dans ce cas-là, il faudra bien créer le premier point, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis revenir pour souder le premier et l'ordre de création. Il a intérêt à ce que ce soit tous identiques, sinon vous risquez d'avoir des croisements lors de l'élévation avec l'outil loft. Bien, mais ici je n'aurai pas ce souci. Pourquoi, regardez bien, je viens de quitter le mode sous-objet. Et je vais tout simplement basculer en Move, W au clavier ou curseur de droite Move, et dupliquer en appuyant sur Shift ce cercle, en simple copie. Je peux donc comme ça sélectionner tous les points, curseur de droite, et les mettre en corner. J'obtiens un losange ou un carré, c'est selon, ça dépend du côté que vous le regardez. Je quitte le mode sous-objet. Je vais basculer maintenant en vue left avec L au clavier tout simplement. J'enlève la grille et je vais créer mon chemin d'extrusion. Modifier, ligne. J'appuie sur Shift et je commence à cliquer. Premier clic, deuxième clic, j'enlève Shift, bouton de droite. P de perspective pour voir mes formes. Le chemin est sélectionné. C'est toujours lui que je garde sélectionné dans le cas d'une création avec Loft. Créer 3D, Companion Object, Objet composé. Loft, Get Shape. Je vais prendre le carré. F3 au clavier. Et je déplace directement cette forme. W. Je la déplace sur un axe. Voilà, de telle manière que je puisse dégager les profils. Vous pouvez par exemple revenir sur la ligne qui sert de chemin, modifier, prendre le point du sommet et le bouger pour changer la taille, comme ça, du loft. Le fait que ça suive toujours les formes d'origine, cela signifie, pour rappel, que lors de votre création de méthode, vous avez laissé instance actif. Bien. Je vais maintenant me mettre à 50% du chemin. Get Shape. Je regarde le pointeur de la souris qui change et je prends le cercle. Attention, je vais quitter Get Shape. Si je bouge le cercle, la forme ne bouge pas. Et heureusement. Si je tourne le cercle, ben la forme ne bouge pas non plus. Et si je change d'échelle, ça ne bouge pas non plus. En effet, les modifications que vous faites sont faites avec transformation. Les transformations, pour rappel, agissent sur l'espace-objet. Voilà pourquoi euh, tout ce qui était initiation avant et l'environnement, les fondamentales, étaient très importantes. Les instances ne se font pas sur les espaces-objets. Les espaces-objets sont influencés uniquement avec les notions d'enfants-parents. C'est pour ça, pour rappel, qu'il faut faire très attention à ne pas changer l'échelle d'une manière non uniforme. Ça, c'est pas bien. Les instances se font sur les composants, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de l'espace objet. Autrement dit, les points, les segments ou toute la forme. C'est ces choses-là qui sont instantisées avec les résultats d'autres types de créations, comme par exemple chez Merge Procutter ou le loft dans notre cas. Autrement dit, si je sélectionne la ligne, je vais demander de désactiver les points, et que je fais un changement d'échelle, ça suit. Vous voyez C'est ça qui est instantisé, ce sont ces composants. J'aurais pu, il est vrai, sélectionner mon loft, aller dans ses composants shape, le prendre et changer l'échelle. L'avantage de changer l'échelle de celui-ci, c'est que ça va changer toutes les lignes qui correspondent à celui-ci comme lien. J'aurais pu directement descendre dans la pile aussi et prendre son composant spline. Mais enfin, ici, c'est un peu stupide. Par contre, je peux prendre son composant vertex et directement le bouger. Je le sélectionne, W pour être en move, et je modifie son composant. Comme il est instantisé, on remarque directement que l'instance suit sur la forme d'origine. Je reviens sur le Loft Shape. Vous voyez qu'il est très important de comprendre bien la navigation dans ce qu'on appelle la pile des modificateurs. Je descends. Je prends celui-ci. J'appuie sur Shift et je duplique. Je demande une copie. Je descends celui-ci le plus bas. Alors n'allez pas trop bas parce que sinon vous allez avoir une incompréhension. Il faut quand même lui laisser une petite distance pour qu'il y ait une élévation des profils sur le côté. Je continue avec Shift et je mets un cercle. Je prends le carré, Shift, je vais tout en haut. Et je continue comme ça ma création. Il est comme ça très facile de créer une simple colonne en partant de deux cercles. Si on veut un renfoncement à un endroit, je sélectionne, je retrouve ici editable spline. Je peux prendre le point, le composant et modifier. Celui-ci, étant donné qu'il est en mode copy, n'influence plus son origine. On voit comme ça qu'il est quand même assez intéressant de pouvoir placer okay, et modifier des points. Si je me remets en mode shape ici, je peux tout à fait le glisser et venir le remettre où je veux. Je vais supprimer, redupliquer et remettre. Voilà, le plus près possible. Pour obtenir cette colonne. Nous allons observer maintenant le maillage en appuyant sur F4. Comment fonctionne le maillage du loft et comment les shapes sont alignés. Bien. Alors lorsque je clique sur shape, je retrouve forcément ces positions qu'on peut venir comme ça précisément bien placées. Et on remarque aussi que nous avons une subdivision. Cette subdivision est égale entre chaque shape. En effet, j'ai un shape qui est ici, qui est le cercle que j'avais transformé en rectangle, et j'ai un autre shape que je viens de placer à cet endroit. Très bien. Si vous avez du mal de voir les shapes, vous pouvez basculer en mode filaire. Okay et il est des fois plus intéressant comme ça de les voir en supprimant le filaire affiché avec F4. Très bien. Néanmoins, j'ai besoin de le voir pour l'exercice, enfin, en tout cas la compréhension. Entre chaque étape du... Comment je veux dire Chaque étape de, des lofts bien placés, c'est-à-dire des déchets, par contre, pardon, des déchets bien placés, entre chaque étape, je vois que j'ai une subdivision qui change de proportion. Elle change de proportion tout simplement parce que son nombre est identique. 1, 2, 3, 4, 5, et la ligne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et la ligne. Autrement dit, ici, ce n'est pas une répartition qui est due par rapport à la distance, mais c'est une répartition par rapport à son nombre. Ce principe de Pau se retrouve dans le loft. Pau, bah, le skin paramètre. Adaptatif, passe, steps, tout simplement. Et on retrouve le, chi le, 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 pardon, le chiffre 5 ici. 5. Je peux en mettre un peu plus. J'ai un choix. Je vais en mettre par exemple 10. Ici, 10 se met sur toute la forme. Si je calcule ma segmentation, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Par rapport... Au shape déjà existant qui rajoute forcément des subdivisions. Si je coche adaptatif, les 10 se retrouvent entre chaque étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. C'est un choix. Si on veut une répartition homogène sur toute la forme, passe, on rajoute. Maintenant, attention. Généralement, les formes de base ne doivent pas être trop subdivisées, car on rajoute souvent un lissage par la suite. En effet, au-dessus du loft, vous pouvez rajouter un lissage maillage, subdivision de surface du type turbo smooth. 1, 2. 1, 2 va en fait subdiviser une ou deux fois en plus la division qui est ici. La problématique du Turbo Smooth, on remarque, c'est que ça ramollit tout. Nous verrons par la suite s'il n'y a pas d'autres techniques plus intéressantes. Néanmoins, ne perdez pas de vue que généralement toutes les formes seront subdivisées. Donc, au départ, ne rajoutez pas trop de subdivisions car ça risque complètement d'être ingérable. Très bien. Alors, le Shape Steps, c'est la division que vous avez tout le tour. En effet, si on observe ici, chaque côté est divisé en une série, comme par hasard, par défaut le chiffre 5. C'est celui-là que nous retrouvons ici. On peut bien sûr en rajouter aussi. Vous pouvez rajouter comme ça une subdivision par rapport au profil ou le long du chemin. On va tout remettre par défaut pour notre exercice ici de départ. On viendra, vous en faites pas sur le skin pour voir deux trois petites choses. Alors, ça s'appelle le skin paramètre, c'est simplement sur les pots du loft. Rien à voir, bien sûr, avec les fonctions skin d'animation. Je vais enlever euh, F4 pour ne plus voir cette subdivision. Je retourne dans Shape. Il est des fois pas aisé de bien comprendre où j'ai bien pu mettre ma forme. OK D'autant plus que si vous faites ce genre de choses, les CTRL-Z ne fonctionnent pas très bien. Les CTRL-Z agitent sur le skin, mais pas sur le déplacement de la forme. Bien, donc pour essayer de voir un peu où toutes les formes sont alignées. Bon, ici, comme le CTRL-Z n'a pas fonctionné, j'ai dû remettre les, les skins correctement comme auparavant. Donc ici, je, je bouge mon, mon shape, en fait, et je me rends compte que, bon, ben, je n'ai pas facile à pouvoir l'aligner. En fait, dans le... quand je suis en sous-objet shape, j'ai le menu compare. Alors le menu compare, c'est un menu témoin, il n'est pas interactif avec la scène. Vous cliquez sur l'icône pick shape et vous allez chercher par exemple une des formes. Attention au niveau où vous cliquez, c'est des fois un peu spécial et surtout euh, qu'il va prendre en compte le Z de la vue. Donc on risque de prendre d'autres formes, enfin c'est pas grave. Ici, j'ai pris mes deux formes. Je vois bien l'alignement des premiers points. C'est pour ça que j'ai tant insisté sur la théorie. Ceci, c'est le chemin. Donc, on voit bien que toutes les formes sont alignées sur le chemin. Alors, euh, ça, c'est un témoin. Je ne peux pas cliquer donc, dans la vue. C'est ce que je vous expliquais auparavant. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement en sous-objet shape et vous pouvez déplacer dans la vue pour essayer d'aligner correctement euh, manuellement. Soit en déplaçant ou éventuellement en rotation. Donc euh, voilà, mais ce n'est pas facile. Alors en rotation, ben, ça me permet d'essayer d'aligner le premier point par rapport à l'autre point. Et si on exagère, soit on contrôle les torsades, soit on comprend euh, d'où viennent ces torsions. Celles sont dues tout simplement à la projection euh, ou la prolongation, je dirais plutôt, des premiers points d'un point vers un autre. Je vais essayer de le remettre. Ben en fait, il y a beaucoup plus simple. Il y a des outils d'alignement automatique. Centre, Left, Right, Top, Bottom. Okay. Et je vais leur remettre centré. C'est beaucoup plus simple. Donc, soit les torsades sont utilisées pour tourner, euh, soit elles sont faites bon, comme ça pour les, euh, les aligner ou pour corriger. Bon. J'ai ici, je retourne dans Editable Spline et je bouge euh, le, le point de ma forme. On peut remarquer que la forme d'origine ne bouge pas. En effet, lorsque j'ai fait une copie sur le loft, euh, ben, ce n'était pas une instance, vu que par définition, c'était une copie. Donc si je reviens en shape, que je fais put, je peux mettre le nom que je désire. Okay Et donc il va, euh, ben, ici je vais mettre test, par exemple test shape, en, en mode euh, copie. Non, je ne pense pas, je crois que je vais faire une instance. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le changer en termes d'instance. Je pousse donc en instance uniquement cette forme. Pour retrouver ma shape instance, soit vous appuyez sur H et vous retrouvez test spline, elle est là. Et automatiquement, il a gardé en mémoire le point. J'ai comme ça deux shapes qui sont en instance, celle de la base et celle que je viens de pousser maintenant, qui me permet comme ça de contrôler éventuellement une shape intermédiaire. Avec tous ces outils, il y a vraiment moyen de modéliser des formes très complexes. Passons maintenant à la subdivision du loft, comment elle fonctionne. Alors je vais euh, revenir à mon loft de base et je vais dupliquer au milieu ma forme. Une simple copie suffit ici. Qu'est-ce que je remarque Le fait de rajouter une forme, de la déplacer, je remarque que la subdivision s'adapte par rapport à la distance de chaque forme, de chaque shape, l'un par rapport à l'autre. En effet, ma forme, je viens de jouer un petit peu avec sur sa position, la voici. Il y en a une autre à cet endroit et une autre à cet endroit. Bien sûr, il y a encore les autres qui sont au-dessus, mais on ne va pas trop s'en occuper pour le moment. J'obtiens une, deux, trois, quatre, cinq subdivisions entre chaque forme. Et je peux remarquer que cette division est par rapport à la hauteur. Autrement dit, par rapport au chemin. Le passe. Puis, par la suite, je remarque une, deux, trois, quatre, cinq subdivisions par rapport à la création de formes d'origine de base, c'est-à-dire par rapport au shape. Si je reviens sur la fonction loft, je retrouve ici surface paramètre, passe paramètre, skin paramètre. Comme d'habitude, je vais tout fermer pour être beaucoup plus rapide. Close all. Pass paramètres. Skin paramètres. Je développe le skin paramètres. J'ai ici les étapes. Cinq étapes par rapport à la forme. Cinq étapes par rapport au chemin. Je vais refermer et remonter ceci pour retrouver ce menu à cet endroit. Bien. Donc cinq étapes par rapport au shape. Une, deux. 3, 4, 5 par rapport au shape qui fait le profil. Et 5 étapes entre chaque forme 1, 2, 3, 4 et 5, ce par rapport à la hauteur. Passe, étape 5. Si l'on modifie les étapes, vous retrouvez comme ça plus d'étapes par rapport au shape ou plus d'étapes par rapport au chemin. Si vous désirez que ces étapes ne soient pas par rapport à chaque zone où les chefs ont été inclus, vous pouvez désactiver Adaptative. Et à ce moment-là, la subdivision chiffrée ici, 32, 6, 61, s'adapte par rapport à tout chemin. N'en mettez pas trop, vu que nous allons utiliser par la suite, dans les modelings avancés, des subdivisions du type Turbosmooth ou autre. Vous avez aussi une interpolation qui se fait en mode arrondi. On peut changer tout ce type d'interpolation du mode linéaire ou autre. Les interpolations, c'est le passage d'étape en étape. Vous remarquez que c'est arrondi. Si vous voulez une interpolation linéaire, il suffit simplement d'activer l'option linéaire. On retrouve le fameux principe des flipper les normales, c'est-à-dire pour inverser les normales. Flipper les normales. Bien sûr, c'est peut-être à éviter. Les quad side, c'est-à-dire que les formes qui vont être sorties seront tout simplement en quad, c'est-à-dire en carré, et non en triangulation. On peut considérer qu'on fait comme ça, on facilite le travail d'un objet polygonal par rapport à un objet édité maillage. Bien, on va voir par la suite d'autres choses. Vous pouvez voir le skin ou ne pas voir le skin. Vous pouvez voir le skin ou ne pas voir le skin. C'est un choix, bien sûr. Voilà pour ce qui est de certains paramètres de subdivision de la peau. On va voir par la suite les déformations les plus importantes okay, qui existent. Dans les déformations, nous avons les choses les plus importantes qui existent, comme par exemple le scale. Lorsque vous cliquez sur scale, vous pouvez modifier l'échelle de votre forme. Alors comment fonctionne le scale Par défaut, les deux axes sont bloqués, c'est-à-dire qu'on vous a travaillé l'échelle en symétrie. Les deux axes sont x et y. Ceci est une fenêtre qui va vous permettre d'afficher l'axe x, y. Ils sont bloqués parce que le cadenas les bloque, tout simplement. Le cadenas signifie que le changement d'échelle aura lieu d'une manière symétrique. Alors, à quoi correspond ce menu alors, on va essayer de l'expliquer de en dessinant sur mon écran comme ça. Alors, le centre de l'objet est en fait symbolisé ici. Voici chaque forme qui ont été imposées dans la forme du loft pour créer comme ça cette sorte de colonne. Chaque forme est ici. La première, la première, la base, c'est celle-ci. Par la suite, par rapport à l'élévation du chemin, on continue. Très bien. La dernière se situe donc à cet endroit. Et on retrouve les intermédiaires ici, tout simplement. Voilà. Ceci est l'axe rouge. Rouge parce que x. Rouge parce que x. Vert parce que y. Vert parce que Y, ce sont les codes que nous avons vus tout au début. Il faut bien savoir que ceci travaille par rapport à l'objet, nous sommes en, en termes de modélisation dans l'intégrité même d'un objet 3D. X, Y sont simplement la création du plan de départ d'extrusion. Le Z étant le chemin. Le Z étant le chemin. On travaille donc bien par rapport à ma forme et son ordre de création. Vérifions. Si je prends ce point et que je réduis, je change tout simplement l'échelle d'une manière homothétique, c'est-à-dire proportionnelle. Vous avez différents types de manipulations. Les types de manipulations proposées sont simples. Libre, uniquement à l'horizontale, uniquement à la verticale. De quoi simplement monter ou éventuellement pouvoir déplacer à l'horizontale ou à la verticale. Quand je dis monter, vous pouvez bien sûr descendre. Celui qui est proposé par défaut est en main libre et vous permettra d'aller dans tous les sens. Évidemment, les deux points qui sont aux extrémités, vous ne pourrez pas aller vers l'intérieur ou aller vers l'extérieur. Pareil pour lui d'ailleurs, impossible d'aller vers l'extérieur ou l'intérieur. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que le chemin a imposé comme distance d'extrusion. Alors, me direz-vous à quoi ça sert ben Parce que vous pouvez créer, et créer, alors c'est marrant, si j'observe créer, c'est les mêmes types d'icônes. En effet, créer, vous remarquez que c'est une étoile. Dans Max, souvent créer est symbolisé par une étoile ou un point lumineux. Si je suis sur créer, je peux créer un point et encore un point. Je bascule maintenant en modifier et je peux comme ça modifier les points. Bien. Et on peut comme ça changer l'échelle. Les points sont manipulables toujours de la même manière. Curseur de droite. Et là sur le point, vous retrouvez une gestion traditionnelle. Corner, c'est-à-dire en segment de droite, ce que nous avons ici par défaut. Bézier-Smooth, c'est-à-dire des poignées qui seront en symétrique. Et Bézier-Corner, c'est-à-dire une poignée qui sera en asymétrique. Bien sûr, dans le cas de l'extrémité, les mouvements de poignées seront toujours asymétriques, puisqu'il n'y a rien vers l'infini et au-delà. Vérifions. Curseur de droite, Bézier-Smooth. Curseur de droite, Bézier-Corner. Curseur de droite, Bézier-Smooth est inactivable. Bézier-Corner. Ce qui vous permet d'avoir comme ça des gonflements okay, ou des choses un peu plus particulières. Et ça va très vite pour modéliser. Ouais, comme ça, on a déterminé des profils et on modélise très très vite différents types de formes. Pour l'instant, je travaille en symétrie. Si je désactive la symétrie, les mouvements que je fais sur la ligne X, c'est-à-dire sur le profil X, ne seraient pas percute pas sur Y. Je peux déplacer la ligne et le point parce que je suis en mouvement libre. Et à ce moment-là, je peux faire un étranglement à différents endroits sans m'occuper de ce qui se passe sur Y. Si j'affiche Y, voilà ce que je retrouve. Si j'affiche les deux, je peux manipuler les deux en même temps afin d'essayer de revenir soit à la modélisation d'origine, ou à certains paramètres qui correspondraient plus aux étranglements à certains endroits qui m'intéressent. Vous pouvez supprimer le point qui vient d'être fait, ou supprimer toutes les modifications soit de vous supprimer, soit de vous désactiver, et vous y revenez si ça vous intéresse. Allons un peu plus loin maintenant avec cet exercice, utilisant les formes loft et la déformation scale. Je vais créer tout simplement, mais alors là vraiment je ne vais pas faire grand-chose, hein, un cercle, comme toujours, voici, et un rectangle. Je vais vite, je n'ai pas trop le temps. Donc, je vais créer maintenant une ligne. Imaginons que je sois en production. J'agrandis la vue frontale, j'appuie sur Shift, je clique en bas, je monte, j'arrête la création de la ligne. Je viens sur la vue perspective, Alt W pour l'agrandir et G pour cacher la grille. J'ai maintenant une ligne et mes profils. La ligne est sélectionnée, créée, 3D, objet composé, Loft. Je vais faire Get Shape et je vais prendre le cercle. Je déplace, curseur de droite, Move, la forme qui vient d'être créée, mon loft. Je voudrais ça un peu plus grand, je vais dans Modifier, je sélectionne le chemin, son sommet, je sélectionne le sommet du haut, et je monte, tout simplement. Je reviens sur le loft, et je vais me mettre maintenant en mode Création. Surface Paramètres, Passe paramètre. Je vais mettre à 50 rapidement Get Shape, le carré. Très bien. J'observe une rotation parce que j'ai oublié le principe des premiers points. Je dis bon, c'est pas grave que cela enchaîne. Je vais sur Shape, Compare, Pic. Je prends le cercle et le carré. Pour que tout soit correct, je vais donc quitter le mode sélection pick shape je prends le cercle et je tourne en rotation pour avoir ça correctement aligné donc il suffit de regarder pour la pour le principe de compare ici je vais prendre lui et changer son échelle un peu plus étroit et un peu plus petit très bien j'ai simplement fait un carré et un cercle je vais maintenant modifier le placer à cet endroit et ben c'est tout en fait j'en ai même pas besoin je vais même pas remettre un deuxième je vais rien faire du tout je vais directement aller sur loft scale très bien je vais maintenant créer des points où j'en ai besoin je vais créer une sorte de ciseau à bois ou de tournevis tout dépendra de la vision que vous pouvez en avoir de l'objet que je vais faire je vais créer un point à cet endroit et modifier le point d'origine et réduire son échelle à sa plus petite expression. La ligne, pour l'instant, est complètement linéaire. Curseur de droite, Bézier corner, et je vais faire un arrondi. Très bien. Je vais recréer une ligne à cet endroit, et je vais déplacer. Je vais le mettre en mode Bézier smooth. Je vais recréer un point et le déplacer. Je vais mettre en baiser smooth pour faire un arrondi. Je vais maintenant recréer encore un point, le déplacer. Voilà, voilà. Vous voyez comme quoi ça va relativement vite. Apparemment, le cercle n'est pas encore très bien aligné. Shape, rotation. Je reviens sur Loft Scale. J'aimerais maintenant biseauter cette partie. Je vais enlever la symétrie et utiliser le changement d'échelle sur X ou sur Y. Je ne sais pas trop. Je vais donc sélectionner un point et modifier la taille. C'était donc bien X. Je biseaute comme ça le ciseau de menuisier. Voilà, très rapidement avec le loft, la possibilité de créer une forme complexe hyper rapide. Hyper rapide et soignée dans le maillage. Pour rappel, si vous voulez un maillage je veux dire équivalent partout et non pas concentré par rapport aux lignes, skin paramètres, vous désactivez adaptatif et vous rajoutez les points qui vous intéressent. On comprend un peu mieux maintenant. Okay. La puissance du loft pour notre tout premier exercice. Nous allons faire maintenant un petit exercice récapitulatif euh, sur une forme un peu plus complexe. Quoique, elle est complexe peut-être au final, mais pas forcément dans son analyse. Alors c'est ce qu'on va faire, on va essayer d'analyser. La vue perspective, euh, je vais la laisser comme ça, les autres vues aussi, et je vais dessiner ce que on va dire ce que j'aimerais bien avoir. Alors. Le truc n'est pas très compliqué. Je me dis bon bah écoute, euh, voilà, j'aimerais bien avoir un, un flacon, voilà un petit flacon. Ok, voilà un flacon de cette manière. Alors euh, ça c'est le bouchon, hein. ah, voilà. Et puis euh, il va se transformer progressivement. Et euh, bon bah voilà quoi. Alors ce flacon, euh, bah ok, ouais. Mais non, j'aimerais bien avoir ici un petit creux. Un petit creux, pas un vide, hein. un creux pour être plus facile à pouvoir le prendre. Et pendant que la personne est en train de dessiner devant vous tous ces délires de design graphique, euh, vous vous devez en fait analyser. Analyser quoi Analyser les profils qui semblent différents. Le profil de base et éventuellement, dans ce cas-ci, le profil où il y a un creux. En effet, en haut, j'ai un cercle. Vous dites donc, je dessinerai sûrement un cercle à un certain moment. Voilà. OK. Puis par la suite, j'ai la forme de base. Bon, la forme de base, j'imagine que ce soit une sorte de cercle déformé. Bien. Et puis j'ai les fameuses formes creuses, euh, dont le designer estime que c'est super révolutionnaire. OK. Et cette forme creuse, la voici. Bien. Le chemin, le voilà, donc le chemin, je le crée sûrement dans une vue. Et ce, en prenant en compte les proportions. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que ne pas oublier le nombre de points lors de l'élévation doivent être identiques. Le problème, c'est que j'ai peut-être besoin d'un point ici, un point là, un point à cet endroit, un point à cet endroit, et éventuellement des points de contrôle pour la courbe ici. Ces points qui sont à ces endroits-là, par défaut, il y en aurait donc 6. Je dois les retrouver aux mêmes endroits. Pareil pour ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien sûr, construit dans le même sens. Tout ça étant trois formes ayant leur espace objet différent pour pouvoir venir les mettre et créer comme ça mon loft. Eh bien, passons à l'acte et regardons ce que ça donne. Je vais donc créer mon cercle, parce que j'ai souvenir bien sûr du designer et de son fameux flacon révolutionnaire. Ce cercle, je vais le convertir en spline pour accéder à ces points. Pour rappel, j'ai besoin de deux points supplémentaires, un ici et un là. J'utilise l'outil Refine qui me permet de ne pas déformer les courbes. Là, je vous invite à voir euh, les fondamentaux, bien sûr, sur les lignes. Je quitte le mode sous-objet et je duplique cette forme, tout simplement. En copie. Cette forme dupliquée en copie, j'édite les points. Très important, je prends ces trois points et je les tire tout simplement avec l'outil Move vers l'extérieur. Alors ce que je viens de faire est assez intéressant parce que le fait d'avoir bougé ces points-là dans ce sens-là et non pas tiré dans les deux sens, lorsque je quitte, je remarque que le point pivot reste à cet endroit, au même endroit que l'origine. En effet, pour explication, le point pivot est ici, à l'origine. Ben pour la copie, le point pivot est au même endroit. Donc le fait d'avoir tiré les points qui étaient ici, je les ai simplement écartés du point pivot. Éviter de déplacer les points dans ce sens-là. Parce que lors de l'élévation, toutes les formes vont venir s'aligner au pivot. Et on risquerait d'avoir une forme ronde ici, et une autre comme ceci, par rapport au point pivot. La forme donnerait donc un effet de sous-coupe, et je n'aurais pas du tout la ligne droite d'un côté, et le flacon qui va venir se remettre ici. Donc il est très important que les points s'éloignent par rapport au pivot. Bien, nous voyons ça par la pratique par la suite. Alors je reprends cette forme et je duplique à nouveau. Le fameux étranglement révolutionnaire qui permet de prendre la bouteille. Je prends donc ces points-ci, j'y vais et je modifie comme ça la courbe de Bézier. Ok, j'ai comme ça toutes mes formes. Je vais créer le chemin d'extrusion dans la vue frontale. Je crée donc une ligne de bas vers le haut en appuyant sur Shift. Shift, je clique, je maintiens Shift enfoncé, je clique, je lâche Shift, bouton de droite pour arrêter la création de la ligne. J'active la vue perspective avec le bouton de droite, comme ça ma ligne reste sélectionnée. Alt, W, Z pour recadrer tout sur la ligne. Bien. Je vais dans Création 3D, Objet composé, Loft, Get Shape, je suis à 0, c'est-à-dire la base du chemin, donc je prends la forme de base. Très bien, je vais dans Modifier, je déplace la forme. J'ai maintenant ma forme de base. Je vais me mettre sur un certain pourcentage du chemin, je veux dire par exemple 50% comme d'habitude. Get Shape, je prends l'étranglement révolutionnaire. Je mets maintenant à 100% du chemin, c'est-à-dire tout en haut. Get Shape, je prends le cercle. Voilà, vous avez toutes les formes qu'il faut. En effet, si je bascule dans les composants du loft Shape, je peux prendre celui-ci et le descendre. Bon, ce que je vais faire, c'est Shift pour pouvoir le descendre une fois, en termes de copie. Et encore une deuxième fois. Alors pourquoi je descends une deuxième fois oh, Ça va me permettre de rajouter un petit détail qui va être simplement l'étranglement du flacon. Maintenant, je descends cette forme-ci. Je me rapproche de lui. Je continue. Je le double. Je prends la base. Je continue. OK. Je peux changer son échelle. Replacer. Replacer celui-ci. Changer aussi éventuellement son échelle pour obtenir une petite progression dans la modélisation. Okay. Et on a comme ça facilement des profils souhaités. Okay. Et on peut personnaliser à loisir très rapidement une forme. Vous voyez donc comme quoi le loft est assez puissant. Si vous désirez modifier éventuellement l'échelle, il n'y a pas de souci. À votre plus grand loisir, vous allez dans Déformation Scale. Vous avez ici la base et ici la hauteur. Ok. Donc, si je veux légèrement biseauter le bas, souvent rapidement, j'utilise l'échelle. Bézier. J'arrondis. Et je biseaute comme ça le bas. On va faire pareil pour le bouchon du haut. Je crée un point. Je sélectionne ce point. Bézier Corner. Je descends. J'arrondis. Et voilà. Très simplement, on a comme ça une modélisation hyper rapide. Une autre approche euh, du loft euh, en exercice, euh, d'une forme qui pourrait sembler un peu complexe à faire au départ, mais nous allons voir maintenant si c'est si compliqué que ça. Je vais créer un cercle, convertir en spline, dupliquer ce cercle. OK. Je vais descendre simplement le point, légèrement. Je quitte le mode sous-objet. Je duplique le cercle en copie. Je descends à nouveau le point, mais cette fois-ci, j'écarte les deux autres points du sommet avec l'option Scale et en cochant l'option Centrer au groupe la transformation échelle. Je prends les deux points, curseur de droite Move. Je vous montre comme ça toutes les différentes techniques okay. possibles pour modifier les points. N'oubliez pas, si vous êtes bloqué sur un axe, les raccourcis clavier. Je vous rappelle, F8 pour basculer sur deux axes, F5 pour X, F6 pour Y et F7 pour Z. Bien, j'ai comme ça trois formes un peu différentes. Maintenant, je vais créer le chemin dans cette vue top. Lorsque vous créez le chemin, pensez bien à l'épaisseur. En effet, je vois ici mon cercle. Pour éviter des manipulations un peu trop, euh, je dirais exagérées, ça ne sert à rien. Je vais bien penser, voilà, à mon chemin. Alors, qu'est-ce que je raconte ben, C'est très simple. Si mon cercle était grand, lors de l'élévation et du fait de changer ici d'orientation, arrivé à ce stade, il aurait pénétré et le maillage n'aurait été pas terrible. Le fait d'avoir fait un cercle un peu plus petit ou un chemin un peu plus grand, ça me permet d'éviter toute pénétration lors d'un changement d'angle quand le, la forme va voyager sur le chemin. Bien, j'ai sélectionné mon chemin et je vais directement sur création, objet composé, loft, get shape, je prends le premier. Je vais basculer sans trop réfléchir toujours pareil à 50%, get shape, je prends le second. Je mets maintenant à 75%, 75% pour la version belge, et je prends ma dernière forme. Je vais maintenant regarder ce que ça donne ici. Alors au départ, je ne vous cache pas qu'au départ, ce que j'aurais voulu faire, je vais dans modifier, c'était une cuillère ou une sorte de pelle. Bon, inutile de vous dire qu'elle vient de se prendre un camion. Alors, ce que je vais faire, c'est modifier l'orientation du chemin. D'où l'importance de bien faire le chemin dans la bonne vue. Mais ce n'est pas grave, regardez le chemin. E pour être en mode rotation. Accrochage à la rotation. Et je tourne mon chemin tous les 5 degrés. Je regarde en bas, c'est-à-dire ici, lorsque j'atteins les 90 degrés. Voilà. Ah, c'est déjà un peu plus sympathique. Bon, quoique. Je vais maintenant changer tout simplement les formes ou l'échelle lors de l'élévation. Avec quoi ben Avec Loft déformation scale. Et là, ça va être tout à fait magique. Je vais créer un point là où il y a la ligne à 75, c'est-à-dire ici, et je vais modifier le point final. Curseur de droite, baiser corner, et je fais un arrondi. La subdivision qui est peu heureuse à cet endroit est due simplement au nombre de 5. Vous vous souvenez que par défaut, j'ai 5 étapes. 1, 2, 3, 4, etc. Donc ce que vous obtenez ici, l'angle droit, où les, les erreurs de modélisation sont dues simplement au chiffre 5 que l'on retrouve là. On pourra par la suite les augmenter pour obtenir une meilleure subdivision. Bien. Je vais continuer et aller maintenant à l'arrière de mon objet. Je déplace. Vous pouvez directement entrer la valeur ici, c'est-à-dire ici si je mets 0, il se positionnera pile poil à 0, c'est-à-dire au milieu. Bézier corner pour obtenir un arrondi du plus bel effet. Je peux rajouter par rapport à certaines lignes qui ont été mises des déformations pour avoir des étranglements ou autres. Je peux quitter le mode symétrique pour être en asymétrie. Ce qui va me permettre, par exemple, d'aller sur Y et de gérer un écrasement à certains endroits pour avoir un design ou un gonflement du manche. On peut revenir sur les shapes. Les shapes, lorsque vous allez les prendre, vont suivre automatiquement le chemin. Si je sélectionne le shape que je suis sur Move, je prends l'axe Z et je vois que je peux voyager pour personnaliser un peu mieux. Ils vont directement se voyager et se mettre sur le chemin. Vous voyez comme quoi le loft est quand même un outil très intéressant. Vous pouvez bien sûr sélectionner le pass, éditer la ligne et les points constituants pour modifier éventuellement la position de la courbe okay, de cet objet. Voilà un des outils les plus puissants de modélisation qui est le loft. Avec ce que nous venons de voir maintenant, nous pouvons sans souci arriver à modéliser ce type d'objet. Ceci, ceci, pas encore les connexions, ceci est une booléenne et tout ça en fait. C'est vers ça que progressivement ma formation est axée. C'est pour aller à, arriver à faire ce genre de scène très simplement, très rapidement, pour que vous soyez satisfait bah, de la formation que je suis en train de, de faire avec vous. Alors, ici, je, ben voilà en fait où on va aller. Quoi. Donc ici on se rend bien compte du principe, c'est un loft, ça c'est un late. Okay. Euh, ça aussi c'est différents profils, ça c'est une petite bouléenne okay, bon on va pas, c'est pas grave. Par contre la collection ici on ne l'a pas encore fait. On pourrait éventuellement le faire avec un objet com composé qui était connect. Le loft propose des déformations comme l'échelle, mais aussi des choses comme tourner, des torsades, des, du twist. Alors on va faire maintenant un exercice basé sur le twist. On va donc créer tout simplement un cercle. Core. Par contre, ici, c'est intéressant ce que je vais faire. Je vais le convertir en spline et je vais dupliquer en mode sous-objet. C'est-à-dire que ma duplication va avoir lieu dans l'espace-objet de mon spline. Je vais utiliser Move et je vais simplement le déplacer. Une fois et encore une fois. J'obtiens comme ça trois cercles qui sont dans le même espace-objet. Par contre, le point pivot est toujours relatif à ma première création. Il est important pour cet exercice de mettre le point pivot au milieu, car c'est là où le chemin, lors de l'élévation, va venir s'attacher. Hiérarchie, affect pivot, centre to object. Vous quittez affect pivot. Pour ce genre de choses, je vous invite toujours à aller voir les fondamentales. Ok. On y va. Je vais maintenant créer la ligne. Et c'est ici où il faut le faire attention. En effet je dois faire une ligne qui est assez conséquente par rapport à ma forme. Left, je suis dans la vue left, la vue gauche, je recule, je recule, je recule, et je vais créer maintenant une ligne. Bien. Je vais me mettre en mode perspective, P au clavier, et j'observe. La ligne est sélectionnée. Créer 3D, objet composé, le loft. Comme ma ligne est le chemin, je vais donc sur Get Shape et cliquer sur celui-ci. J'ai les trois cercles qui se positionnent nickel par rapport à mon chemin. Nickel, cela signifierait dans mon langage que le point pivot étant bien mis au centre, les trois cercles se positionnent d'une manière correcte par rapport au chemin et son centre. Vous pouvez remarquer que les modifications ne sont pas visibles lorsque vous êtes en mode créé. Lorsque vous êtes en mode créé, les déformations comme scale et twist que nous allons voir ne sont pas accessibles. Il faut aller dans modifications pour accéder aux déformations. Twist. Le twist, c'est pareil, sauf qu'il est beaucoup plus limité en termes de, je veux dire, de contrôle. On peut comme ça avoir une rotation de la base par rapport à l'extérieur, enfin, la fin de la forme, etc. Ici, si je fais une rotation de 100, c'est une rotation de 100 degrés. Euh, c'est un peu peu. On va mettre ici une rotation de moins 1000. Et on va prendre ce point et on va mettre une rotation de plus 1000. Vous pouvez zoomer sur tout. On voit ici une rotation de moins 1000 degrés à plus 1000 degrés. Et voilà ce que vous obtenez. N'oubliez pas de rajouter des segments le long du chemin. Passe, steps pour obtenir comme ça facilement le principe d'une corde ou d'un fil barbelé. Qui plus est, cette modélisation est toujours instantisée avec la ligne. Donc, vous pouvez modifier à loisir les points de baisier de la ligne et donc animer facilement la corde. Bien, voici un exercice complet sur les déformations du loft, le tout en un. Le tout en un, en fait, ben, c'est tout simplement voir toutes les déformations principales. Maintenant, vous avez un peu l'habitude avec le loft. Alors, on va créer des profils basiques. Ok, donc euh, je vais tout simplement créer Endgone. Euh, Endgone, ben, le voici. Hein. Je vais le convertir en Editable Spline. Très bien. Je vais le déplacer en copie sélectionner tous les points CTRL A et les mettre en mode smooth bien je crois que ça va me suffire pour ça et je vais même m'amuser oh, en dupliquer encore un petit peu allez je vais en dupliquer un autre voici ok en simple copie lui je vais réduire les points là c'est vraiment pour m'amuser voici et tous les points, je vais les mettre en mode corner. Bien, comme ça, j'ai trois profils légèrement différents, partant de la même forme. Je vais mettre en vue frontale et je vais créer le chemin d'extrusion. Simplement une ligne, shift, je clique, je maintiens shift enfoncé, je lâche shift, bouton de droite. Très bien, voici maintenant tous les éléments que j'ai besoin. Je vais sélectionner le chemin, créer 3D, campaign object, loft, get shape et je vais prendre par exemple cette forme-ci. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin surpasse à 30 get shape, je vais prendre celui-ci. Maintenant, je vais un peu plus loin. 50%, Get Shape, et je vais prendre l'autre. Je vais dans Modifier. Comme ça, je retrouve les déformations. Premièrement, je vais bien placer les formes qui m'intéressent. Je vais donc basculer en sous-objet Shape, et je vais les placer là où ça m'intéresse, tout simplement. Je vais changer un peu son échelle. OK. Et placer celui-ci. Je vais biseauter le bas, cette fois-ci non plus en utilisant simplement euh, scale, mais tout simplement dans déformation, le bevel. Le bevel lui va vous permettre de biseauter. Alors j'y vais, je vais créer un point à la base, je vais prendre l'autre point et diminuer légèrement. On voit comme ça qu'on a un biseau automatique qui se fait. Vous pouvez faire baiser corner, ça correspond plus ou moins à ce qu'on faisait en échelle. Sauf que ici, c'est fait exactement pour avoir un biseautage. Bien. Je ne vais pas en faire trop. Voilà, je vais essayer d'être léger à ce niveau-là. Si vous voulez zoomer tout près ici, vous avez bien sûr ce principe qui vous permet d'être beaucoup plus précis quant à votre travail. Ok. Voilà. Je vais mettre la fenêtre ici. Je vais maintenant mettre Twist. Twist, j'aimerais bien tourner à partir de la seconde forme. Je vais donc créer un point, modifier ce point-là et faire tourner. On voit très bien ici que la forme tourne. Je vais tourner non pas de moins 100, mais de moins 500 par exemple. Voilà. Je vais laisser le twist ici. Je vais maintenant sur Twitter. Alors Twitter, c'est très intéressant, c'est une inclinaison. Je vais donc incliner ma forme. À partir de ce plan Shape. Je vais modifier et regarder, je vais incliner. Évidemment, on ne comprend pas trop l'inclinaison parce que la subdivision dans Skin paramètres est peu heureuse. Lors du chemin, je vais rajouter. Et là, on comprend beaucoup mieux l'inclinaison. Bien, si maintenant je rajoute un petit scale ça va me permettre à cet endroit de faire tout simplement un changement d'échelle pour obtenir une vis. Je peux comme ça rajouter un changement d'échelle à certains endroits et j'obtiens un pas de vis ou un cornet de glace selon. J'ai comme ça d'une manière simple accès à tout. Vous pouvez soit réduire bien sûr toutes les fenêtres, et y accéder quand vous avez besoin, car elles sont là tout en bas. Vous pouvez désactiver pour se dire lequel vous plaît ou ne vous plaît pas, ou lequel peut créer éventuellement un problème. Shape, je peux comme ça réduire l'échelle du Shape et accéder facilement à toutes les options qui m'intéressent. Donc, quand je vous dis que c'est bien un, type de, un des types de modélisation les plus puissants, je euh, savez que ce n'est pas mon habitude de mentir. La dernière des formations que nous allons voir avec le loft, c'est le fit. Alors, pour ce faire, on va démarrer sur plusieurs étapes. On va d'abord créer une ligne. Les étapes sont importantes. Je vais faire un exercice traditionnel qui nous permet une bonne compréhension du loft et du fit. Je vais créer dans la vue top un triangle avec la pointe vers le bas. Je vais par contre ajouter un sommet sur le segment du haut. C'est important. Je vais dupliquer simplement cette forme en copie. Donc Shift avant de déplacer, copie. Je vais créer dans la vue de top le chemin. Shift avant de le créer. Une ligne. Curseur de droite pour arrêter le mode création de la ligne. J'ai fini mes création. Je vais donc modifier maintenant la seconde forme. Z pour zoomer dessus. Je vais descendre ce point. Et le mettre en mode arrondi. Bézier. Modifier un petit peu ses tensions. Je vais faire pareil pour eux. Smooth. Et par la suite, Bézier. Je vais modifier les tensions du Bézier. Voilà. Pour obtenir ce genre de choses. Très bien. Je vais basculer en mode plein écran Alt-W, P pour perspective. Et je vais regarder maintenant ma création. Je prends mon chemin 3D. Objet composé, Loft, Get Shape, et je clique sur le triangle. J'appuie sur F3 pour voir le lissage et reflet. J'ai comme ça un merveilleux Tobleron. Je vais me mettre à 10 sur le chemin, je valide avec Enter, Get Shape, et je prends le second triangle. Maintenant, j'ai tout simplement le triangle qui va vers le triangle creusé. C'est important donc d'avoir créé un point à cet endroit, car ce point étant descendu à cet endroit sur la forme cible, j'ai la forme d'origine et la ligne descend vers la forme cible. Je vais me mettre en mode modifier, basculer en sous objet shape, prendre la forme qui est ici, j'appuie sur Shift et je vais à l'extrême en mode copie. J'ai donc maintenant dupliqué. À cet endroit. Je prends celui-ci et je déplace en copie. Celui-ci, je viens de le déplacer, il est à 50. Bon, des fois les pourcentages sont un peu douteux. Je positionne un peu comme je veux. Au lieu d'avoir maintenant un Tobleron, j'ai un superbe abreuvoir à vache. Rien d'étonnant, mais en tout cas c'est rapide. Je quitte le mode sous-objet. Et je déplace mon objet sur le côté. J'appuie sur T pour revenir en vue top. Ce que je vais faire maintenant est assez amusant. Je vais créer une forme de D avec ligne, n'importe comment, quoique, pas tout à fait n'importe comment, mais pas forcément très soignée. Par contre, je vais respecter la distance. La distance, c'est-à-dire la longueur du chemin. Les formes que je vais créer ne vont pas dépasser la longueur du chemin pour éviter d'avoir des, des tas de petits soucis en fait. Je vais essayer de respecter. Je dis bien essayer, tout cela est donc très approximatif. Je vais créer une forme qui va ressembler à une flèche ou je dirais une porte d'église. Attention, nous sommes en plein style gothique. Et je vais créer une sorte de grand triangle aussi. Voici tout simplement. Ces formes, je vais les imposer sur mon loft. Je rebascule en vue perspective et j'explique un petit peu. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai tant insisté sur certaines choses, certains concepts. Quel type de concept La forme créée ici et la forme de base qu'on l'on retrouve ici. Cette forme est dans son espace objet. On peut considérer qu'elle est en X et Y. Le Z de l'objet, c'est le chemin qu'il génère. Bien. Autrement dit, je pourrais, sur la prolongation X, par exemple, tout va dépendre dans quelle vue vous avez créé, imposer une forme, une sorte de thermomoulage. Je vais venir imposer la forme qui est ici. Et sur la partie Y, je vais venir imposer la forme qui est là, qui va venir s'imposer sur la partie Y. C'est le principe du fit. Vérifions. Je sélectionne ma forme, modifier. Je vais fermer un peu tout ça. Et j'ai ici fit. Bien. Je vais désactiver la symétrie. En effet, comme je vous expliquais auparavant, en X, je veux cette forme et j'en veux une autre en Y. Donc, il n'y a plus question ici de symétrie, en effet. On est loin de la symétrie. En X, je vais chercher la forme. Ça nous rappelle quelque chose. Voici. Et que se passe-t-il en X La forme a essayé d'être imposée. Bien. En Y, je vais chercher l'autre forme. Il l'a imposée en Y. Il essaye tant bien que mal d'essayer de, de vous satisfaire. Alors me direz-vous, tout d'un coup, pourquoi est-ce que cette forme vient de se soulever Regardons un peu mieux, en dézoomant automatiquement sur mes courbes, ce qu'il s'est passé. Pour rappel, ceci Et le pass. Ben, bon, pass, est le passe. Mon passe n'est-il pas à cet endroit Il est donc tout à fait logique. Regardez que la distance qui est ici se retrouve la distance qui est là. Et bien sûr, la même à cet endroit. Mais ce n'est pas grave d'avoir travaillé n'importe comment. En effet, vous pouvez sélectionner tous les points et venir les repositionner par rapport au chemin. Comme par magie, la forme redescend. On connaît aussi un autre principe, prendre ce point et le mettre en mode Bézier changer. On pourrait même en rajouter un si le cœur nous en dit et le modifier. Bien. Très très bien. On a comme ça modifié le profil qui était en Y. Si vous estimez que l'ordre du profil n'est pas bon, vous pouvez faire ici une variation des orientations. Attention. Ceci donc permet de basculer tout simplement les orientations. Je vais revenir à ma forme du dessus. Ma forme du dessus étant créée, comme on dit chez nous, un peu à l'arrache, c'est-à-dire du grand n'importe quoi, le résultat est peu heureux. On va donc essayer de corriger ça un peu mieux. Les points, il faut absolument qu'ils soient collés et mis correctement au bon endroit. Je vais sélectionner tous ces points et être sûr qu'ils soient mis en mode corner. Bien. Ces deux points, je vais les mettre en mode Bézier et celui-ci, je vais le mettre en Bézier Corner. Ce qui va me permettre de faire un arrondi des plus esthétiques. Je prends ces deux points et je recule. J'obtiens comme ça très facilement le profil d'une baignoire, d'une coque de bateau ou autre. Voici un des exercices les plus révélateurs du loft. En moins de 10 minutes, vous avez comme ça okay, une forme complexe créée sur laquelle vous contrôlez la subdivision et autres. Okay. Comme je vous l'ai rappelé la dernière fois avec le mode de segment. Le loft étant donc un outil très complet, voilà pourquoi j'y ai consacré un chapitre et un certain temps. Un fit en plus, alors ici c'est un exercice rapide qui ne va pas prendre beaucoup de temps, okay, mais encore une démonstration des utilisations et de la puissance du fit, et surtout des différents types de, je veux dire, de manipulation de la ligne du spline. Je vais créer tout simplement ce type de profil rapidement. Voilà. Alors, ceci c'est un spline bien sûr, je vais le sélectionner. Je vais vérifier que automatic welding est actif. Je vais faire mirror copy dans ce sens-là. W pour être en move et automatiquement les points vont se souder dès qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre. Je continue le mirror mais dans ce sens-là maintenant, mirror et voici les points qui sont soudés. Ces points ne m'intéressent pas. Je vais donc les supprimer. Et d'ailleurs, celui-ci ne m'intéresse pas non plus. Un peu d'optimisation que j'appelle. Très bien. Je vais faire plus ou moins la même manipulation, mais maintenant une autre technique de travail. Je vais, par rapport à lui, arrondir, descendre, arrondir légèrement continuer à arrondir revenir ici et arrêter ma création je reviens je sélectionne le sous-objet spline je vérifie comme toujours métoriquement il n'a pas bougé automatic welding mirror dans ce sens-là en mode copie dès que je déplace il va se souder je prends les points ici, je bascule en mode sous-objet vertex. Bien. D'ailleurs, je me pose la question, ce ne sera pas plus simple de les supprimer. Bien, bien, bien. Et maintenant, on va au plus simple. Voici les deux formes que je viens de créer qui sont bien séparées. Là, je vais vraiment au plus simple. Je vais créer un rectangle. Et une ligne droite. La ligne est le dernier objet sélectionné. La voici. Créer, 3D, Objet composé, LAFT, Get Shape, et voici. Alors là, franchement, il n'y a pas plus simple. Modifier, Fit, j'enlève la symétrie. Sur X, je vais chercher la forme imposée en son dessus. Je vérifie, c'est tout à fait logique. Et sur Y, cette forme-ci. Et voilà rapidement votre cornet de téléphone qui est modélisé. A vous maintenant de parfaire lors de l'élévation quelques changements d'échelle ou de biseau, mais en tout cas, vous avez la forme qui rapidement vient d'être faite. Voilà, en trois minutes, encore une petite application du fit. Bien, nous allons voir maintenant une des fonctions du loft qui va vous permettre de créer un pantalon, une fourchette ou autre. Ça va vous permettre en fait de préparer une forme qui peut après par la suite être convertie en poly ou aller vraiment aller plus dans l'intégrité de ses composants. C'est un peu une sorte de croquis préparatoire, mais très rapide. Alors pour ce faire, je vais dessiner un cercle dans la vue top. Je vais convertir ce cercle en spline. Je vais aller dans ses composants spline, c'est-à-dire ses sous-objets, le sélectionner. W pour être en mode déplacé, et puis j'appuie sur Shift pour en faire simplement un double dans l'espace sous-objet. Okay. Maintenant, je vais sélectionner les sommets qui sont ici et les séparer, c'est-à-dire tout simplement Break. Lorsque j'ai fait ce genre de choses, les sommets sont maintenant complètement ouverts. Autrement dit, ils sont dans une position commune, mais ils sont bien ouverts. Attention, pour éviter tous les soucis, désactivez automatic welding. Sinon, vous risquez en vous rapprochant de tout simplement souder vos deux sommets, ce qui est loin d'être le cas ici. Je quitte le mode sous objet et je remarque que le point pivot est toujours sur le cercle d'origine. Je préférerais franchement qu'il soit au milieu. Je vais donc dans Hiérarchie, Affect Pivot, Center to Object. Voici mon premier plan d'extrusion contenant deux cercles avec une ouverture à l'intérieur. Je vais dupliquer ces deux cercles et je vais maintenant tout simplement modifier les vertex. Voilà. Et changer leurs... aspects, en tout cas les tensions. Okay, des tangentes qu'il y a sur le côté. Bon, très rapidement et surtout simplement. Je vais fusionner leur endroit commun avec Fuse. Fuse ne soude pas, il fusionne. N'oubliez pas, à condition d'avoir désactivé Auto Welding. Ok, je vais maintenant me mettre dans la vue frontale, ça pourrait fonctionner aussi dans la vue left, c'est simplement pour créer le chemin d'extrusion. Je reviens dans ma vue perspective. Mon chemin est sélectionné, créer, objet composé, loft, get shape, je prends les deux cercles du bas. W pour déplacer maintenant ces deux cylindres. Je vais dans Modifier, je me mets à 100% du chemin, Get Shape et je prends l'autre forme. J'ai maintenant un pantalon qui manque un peu une petite couture. C'est tout. On va donc maintenant amorcer tout doucement notre approche vers l'objet polygonal poly. Le loft, dans ce cas-ci, me permet de faire une sorte de brouillon. On va un peu faire de couture après. Alors, on va regarder la subdivision. F4 pour voir la subdivision. La subdivision est correcte, ce qui me paramètre sur la hauteur du chemin, vu qu'il n'y a pas de forme intermédiaire. Par contre, à mon sens, elle est peut-être un peu trop nombreuse. Voilà. Je vais dupliquer cette forme, en faire une copie curseur de droite, Hide and Select pour cacher tout ce qui n'est pas sélectionné. C'est un peu une sorte de sauvegarde. Et nous allons commencer notre approche avec l'outil Poly. Je vais convertir cet objet en Poly. Convert to Editable Poly. Je peux accéder au point et je vais utiliser une technique très simple, le Weld. Le weld comment fonctionne-t-il? Toujours pareil. Si vous prenez ces points que vous faites weld, ils se soudent. Je prends, ils se soudent et je fais de la couture tout simplement. Je prends ces deux points là, donc avec contrôle les deux weld. Ah, il ne veut pas souder. Ça c'est peut-être embêtant. Alors pourquoi il ne veut pas souder? Parce que c'est tributaire d'une distance. Ici dans l'édit poly, vous n'avez pas la distance vous avez un petit menu qui vous permet de mettre la distance. Et là, on va mettre une distance très grande et on voit automatiquement que les points se soudent. Vous validez avec OK ou Apply. Si vous faites OK, ce menu disparaît. Si vous faites Apply, ce menu reste toujours présent. Et nous allons faire notre couture. Apply. Bien. Je vais faire toutes les coutures. Donc c'est vraiment maintenant... Bienvenue dans le monde de la modélisation. Toujours bien penser à désélectionner les points auparavant. Et on fait notre couture comme ça. Hop. Premier point, second point. Alors je sélectionne avec quoi Tout simplement avec CTRL. Apply. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui va souder. Donc on va agrandir la tolérance. Apply. Pour appliquer comme ça je désélectionne je clique dans le vide et je prends ces deux points apply maintenant les points qui sont ici ça va être pareil voilà apply et maintenant je prends ce point ci et celui ci je fais donc une soudure à cet endroit ok Ouais, J'ai fait OK, c'est parti. Avec ce qu'on connaît maintenant, on peut tout à fait subdiviser avec un Turbo Smooth pour obtenir une subdivision. Et voilà notre pantalon qui est modélisé. Si je reviens sur l'Edit Poly, je peux voir ce que ça donne. L'avantage maintenant de la subdivision, c'est que les points de contrôle... Vont me permettre de prendre par exemple les parties qui correspondent au genou et tirer les parties qui correspondent en haut, donc c'est à dire à la ceinture à la taille, tirer, écraser ce parce qu'un petit orbon point est en train de se faire et prendre comme ça les points qui forment ok notre pantalon, déplacer, scale, petite patte d'éléphant ne ferait pas de tort, revenons à notre mode ancienne des années 70, etc. etc. Vous voyez que l'outil... Loft peut être très intéressant pour préparer un brouillon, pour après par la suite aller en poly. Voilà, maintenant, on peut attaquer l'outil polygonal. Bien, ben pour finir, restons sur le poly. Alors, le poly, nous allons voir ici vraiment les, je veux dire, les bases qui vont me permettre de finaliser un peu cette bonne approche des fondamentales de 3D Studio Max. Alors, pour les polis, Bien, nous allons voir un peu qui regroupe en lui pas mal de petites choses que nous venons de voir en détail. En effet, je vais ici créer une boîte, je vais subdiviser 3, tab, 3, tab, 3. Tab est donc la touche pour rappel avec les deux flèches horizontales à côté de la lettre A si vous avez un clavier azerty. J'appuie sur F4 pour voir la subdivision dans ma scène. Et cette boîte, qui est maintenant subdivisée de 3 et 3 segments, je vais la convertir en objet polygonal. Je vais agrandir Alt W la vue perspective, et je vais reculer un tout petit peu. Je vais m'occuper simplement des polygones. Les polygones, pour rappel, sont des faces à plusieurs côtés. Ici, pour l'instant, les faces ont 4 côtés. Ce sont des rectangles ou des carrés, tout dépendra de la proportion que vous leur avez donnée. Vous vous souvenez tous du modificateur Mesh Editing Extrude. En effet, ce modificateur Extrude, je l'avais utilisé pour une ligne 2D. C'est pour ça que lorsque vous sélectionnez un objet 3D, il est inactivable. Ceci était utilisé pour faire un spline et lui donner une distance. Lorsque vous sélectionnez une face, Voici, vous retrouvez avec le curseur de droite Extrude. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose. Cette face va se comporter comme un plan 2D et il suffit de maintenir la pression avec le bouton de la souris gauche et de tirer. Je répète, curseur de droite, vous sélectionnez une face. Avec le curseur de droite, vous allez chercher le menu Extrude. Le menu Extrude considère que la face sélectionnée est un plan 2D. Avec le déplacement de la souris, vous tirez d'une manière linéaire sur un Z local propre à la face. Ce qui nous donne une extrusion. Bien. Si maintenant je bascule sur la vue frontale, F au clavier, je quitte le mode sous-objet, je fais F au clavier, et je vais créer une ligne. Je crée maintenant une ligne. Très bien. Je bascule dans la vue perspective P au clavier et je resélectionne mon objet poli. Modifier, je sélectionne l'objet polygonal. Je sélectionne cette face ici. Attention, l'ordre de la création de la ligne est important. Je vais retrouver dans les menus extrude along spline. Dans ce cas, je vous conseille d'aller chercher le petit utilitaire qui est sur le côté. Et ceci va se comporter exactement comme le loft. En effet, lorsque vous faites Extrude along Spline, vous allez chercher la spline qui est ici, Pick Spline, et l'extrusion va se faire automatiquement, exactement comme le loft, où on aurait pris le chemin et fait un Get Shape. On peut choisir le nombre de segments, le changement d'échelle, appelé ici Taper. Et le gonflement intérieur. Même le twist, ils y ont pensé. Vous pouvez valider avec Apply ou OK. Si vous validez avec Apply, il continue sa création tout en gardant la dernière orientation du point de la ligne. Cancel. Bien. Je sélectionne maintenant une autre face. Et nous avons vu aussi dans les créations modifier patchpline le late. Pour rappel, le late okay, permettait tout simplement avec un profil de faire tourner. Bien. Je vais donc ici utiliser la même fonction. inch from edge et là je dois aller aussi dans le menu. Pick inch, c'est un peu si vous voulez piquer l'axe de rotation. Lorsque vous avez choisi l'axe de rotation, vous donnez un angle d'ouverture pour qu'il puisse se déplacer et le nombre de segments. C'est donc exactement la même chose avec un axe qui est ici. Au lieu d'appeler ça axis, c'est le hinge, la charnière si l'on veut, l'angle de rotation, ben, c'est l'angle d'élévation, et le nombre de segments, vous les retrouvez ici. On retrouve donc de cette manière les différents outils de modélisation que nous avons vus dans cette partie des fondamentaux. Avec ça, vous pouvez faire déjà pas mal de choses. On va s'amuser pour finaliser correctement notre petite aventure avant d'entamer, je veux dire, un ligne beaucoup plus complexe. Notre petite aventure dans les polygones serait celle-ci. Je vais créer une boîte que je vais subdiviser en 3 tab 3 tab enter. F4 pour voir correctement la subdivision, curseur de droite, convertir en editable poly. Pour tourner, c'est Alt. Je prends le sous-objet face. Je prends ici, je tourne et j'appuie sur CTRL. J'ai donc les deux faces de sélectionner. Curseur de droite, scale. Extrude. Scale. W move. Je prends cette face. R pour scale, W move, R pour scale, curseur de droite extrude. Et vous remarquez que 3D Studio Max est très gentil avec vous. Parce que, euh, comment je veux dire, chaque fois que vous allez prendre un outil, comme l'extrusion, les derniers outils utilisés sont mis en bleu, okay, qui vous permet comme ça de retrouver facilement les dernières fonctions que vous avez utilisées. Bien, bien, bien. On va maintenant sélectionner cette face. Inch from edge. Pick inch, on va prendre celui-ci. Angle. Segment. OK. Je prends cette face. Inch from edge. Pick inch. Je prends ceci. Et il a gardé les angles. Très bien. On va faire maintenant une petite antenne sur le toit. On va mettre en vue F frontale. Je quitte le mode sous-objet. Je crée une ligne. Voilà. Je rebascule en vue P perspective. Je resélectionne ma forme polygonale. Je prends une face. Extrude along spline, je prends le petit menu. Pick spline, voici. Je vais réduire l'échelle. Réduire le creux. OK. Vous venez maintenant d'utiliser tous les outils que nous avons vus pour une création de ligne 2D. Sauf que ici, c'est appliqué à l'objet polygonal. Je vous invite donc maintenant à essayer de voir les modelings un peu plus avancés.